TV. thing. Thank you Bon, on va commencer finalement. Juste vérifier que mon audio est bon. Et j'imagine que oui. Et j'imagine que oui, parce que ça serait dommage de se rendre compte que l'audio est pourri après 6 heures de vidéo. Et que normalement tout va bien. Est-ce que je m'entends Est-ce que je m'entends Parfaitement. Youpi <coughs> Eh bien, bienvenue tout le monde. Bienvenue pour cette, euh, ce cours, cette conférence qui, euh, je pense, est relativement décisif, qui a été conçu euh, à l'origine pour les personnes qui travaillent dans le secteur du numérique comme moi. Je n'ai pas encore toute ma voix, mais ça va venir. Euh, je l'ai conçu comme étant un, un cours relativement accessible, en dehors de, des quelques derniers slides. Euh, qui sont un peu plus techniques, juste avant euh, de dire bisous, au revoir. Euh, on va parler de quelques petits trucs qui sont critiques en ce moment et dans les années à venir. On va prendre un peu de distance sur euh, ce qu'est la planète euh, Terre, ce qu'est l'univers et ce qu'est la matière et l'énergie. On va voir ensuite comment nos espèces ont évolué <coughs> et la direction qu'on prend en ce moment. Euh, on verra aussi les conséquences que ça a sur la biosphère et on parlera des solutions contre les dégâts qu'on est en train de causer et on, <coughs> on se focalisera sur une toute petite, part, euh, une petite partie qui s'appelle le numérique. Et on essaiera de discuter ce qu'on peut faire en tant qu'individu, que société, que structure et que travailleur du digital. Euh, un avertissement liminaire, ce cours dure à peu près 6 heures. Je suis euh, désolé mais pas trop désolé. Euh, mais comme vous allez le voir, il y a beaucoup de choses à dire et c'est très dur de tasser ça et de descendre en dessous. Ce que vous allez voir, c'est le fruit d'à peu près 6 mois de travail de la part de l'individu non spécialiste que je suis. Donc, si vous n'avez pas le temps, étant donné que le sujet est important, je vous suggère de revenir plus tard. Euh, là, on est en live sur Twitch ça sera en replay sur YouTube. Et euh, étant donné les graphismes assez simplistes de cette vidéo, je vais la laisser uploader en 1080 euh, pour que vous puissiez lire certains graphiques, certains éléments visuels qui sont relativement fins à lire et euh, qui parfois demandent un peu de définition le poids final devrait être relativement raisonnable puisque les... ce sont des slides essentiellement, donc c'est assez statique. Inutile de vous dire, on va faire un petit voyage. Euh, ok, donc avant d'aller plus loin, un petit avertissement, euh, parce que ça me paraît important. Euh, si vous n'avez pas enquêté par vous-même à propos du changement climatique, de la raréfaction des matériaux et de l'avenir de l'humanité, vous pourriez être relativement choqué et désespéré à travers cette conférence euh, court euh, je vais essayer de conclure avec des perspectives optimistes cette conférence est hautement perturbante et je vous décommande je vous ne recommande pas du tout de la regarder avec des enfants qui ont moins de 7 8 ans euh, d'abord parce qu'il y a deux trois images qui sont un peu plus difficiles que les autres et que le sujet à expliquer est très délicat et demande un peu de parcimonie et de délicatesse surtout après la première partie euh, maintenant, vous êtes euh, au courant. Si vous êtes encore là, c'est que vous en pensez l'utilité. Avant toute chose, quelques mots à propos de moi pour que vous puissiez me trouver après la conférence. Si vous avez des questions, des notes, des corrections à apporter ou si vous voulez juste discuter, comme dirait Don John Wick, The Manager is always in. Moi, je m'appelle William Pinault. Je suis. Euh on va dire ninja, architecte web, lead développeur, coach agile euh, et euh, conférencier public. J'ai à peu près 15 ans d'expérience informatique, euh, essentiellement dans le web. Je travaille actuellement dans une ESN qui s'appelle NeoSoft en France à Limoges et je suis également enseignant vacataire à l'IUT du Limousin, à Limoges aussi. Et j'ai contribué à des projets open source sur le net autour de l'écosystème web de PHP essentiellement. <laughs> euh, donc je suis. Euh, aussi responsable technique de projet, architecte, etc. Donc vous me retrouverez sur GitHub, GitLab et Twitter. Je vais activer mon pointeur laser magique. Hop là. Sur GitHub, GitLab et Twitter. Et je suis aussi photographe, musicien. Donc vous me retrouverez sur les réseaux sociaux habituels. Hein, YouTube, Instagram, Flickr, 700px, SoundCloud, etc. Euh, je joue aussi beaucoup sur Magic euh, Arena, Apex. Voilà, bientôt sur euh, Back 4 Blood, tout ça. Et vous me retrouverez aussi, donc, comme en ce moment, sur Twitch, sur Facebook, Snapchat, etc. Si c'est votre truc. Avant toute chose, pourquoi est-ce qu'on est ici Alors, au passage, oui, les slides sont en anglais parce que je ferai cette conférence en anglais et en français. <laughs> euh, ben, bah, ça fait quelques mois que je, comme je vous dis, j'ai ardemment étudié ce sujet euh, qui dépasse le spectre de mes compétences habituelles. Et. Euh, je le fais parce que j'ai réalisé à quel point ce sujet était important et à quel point parfois on pouvait savoir que quelque chose allait mal sans nécessairement être euh, très informé du sujet. Euh, on a appris progressivement au cours des dix dernières décennies euh, que progressivement quelque chose allait mal, mais j'ai réalisé qu'on ne savait pas à quel point ça allait mal, donc on répète des chiffres, des nombres et des faits, qui sont souvent justes, hein, mais on ne sait pas à quel point on va vraiment dans la mauvaise direction. Et aller dans la mauvaise direction, ça veut dire en gros que parfois l'angoisse peut être influencée par l'ignorance. Jusqu'à ce qu'on s'y intéresse, et ce que moi j'ai fait il y a quelques mois, et on va traverser un entonnoir à partir de l'univers et de sa formation jusqu'à la Terre, jusqu'à l'atome et aux composants d'un atome. Et prendre un peu de recul sur ce qui euh, existe dans notre monde et ce qui va nous intéresser aujourd'hui plus particulièrement. Deuxième euh, petit warning, euh, petit euh, avertissement introductif et liminaire. Étant donné à quel point le sujet est critique et décisif, euh, j'ai juste pensé que je pourrais faire ma part, ce qui est le but de ce cours. Je suis juste un travailleur du numérique qui essaie de faire sa part du boulot. Pas Plus, pas moins. Je suis pas un ingénieur spécialisé dans les domaines qu'on va aborder aujourd'hui, un peu plus dans le numérique quand même. J'espère que vous me pardonnerez d'avance si les informations sont approximatives ou mal expliquées. Euh, Ce pourquoi je m'en excuse aussi par avance. Euh, je suis pas un physicien ni rien, donc voilà. Euh, vous pourriez avoir entendu parler de ces effets. lultra c'est un, un mot qui est là il y a quelques années déjà, qui vient du latin en fait, qui veut dire simplement que vous ne devriez pas normalement. Euh, vous exprimez publiquement sans une spécialisation en un entraînement ou euh, un minimum d'éducation dans un domaine spécifique qui est celui auquel vous pensez, euh, sur lequel vous pensez parler. Euh, et le, la personne qui doit parler devrait rester dans son domaine. Ça vient du latin, qui veut dire le, le, le cordonnier devrait rester, euh, devrait se contenter de faire des chaussures. Euh, ce biais cognitif, qui est l'idée euh, qu'on peut sortir très facilement de son domaine de compétences, <coughs> est assez dur à combattre, bonjour le Covid-19 et les spécialistes improvisés par exemple. Euh, et c'est aussi nommé d'après après les travaux et les études de deux physiciens, enfin de, de psychologues américains pardon, de la fin du XXe siècle qui s'appellent David Dunning et Justin Kruger. Et on appelle ça l'effet Dunning Kruger. Euh, donc j'ai essayé de vous donner toutes les sources, absolument toutes les sources que j'ai utilisées à la fin de cette conférence et vous allez voir il y en a pas mal. Euh, j'ai utilisé en la mesure du possible le plus grand nombre possible de sources officielles et de sources diversifiées. Mais j'ai certainement pu en rater, ce pourquoi vous m'excuserez par avance. Alors allons-y. On va euh, plonger un peu dans les, les perspectives infinies, et les, les éthers, on va dire, qui nous ont donné naissance à nous, à la vie, à tout. Je vais vous montrer d'abord juste une petite vidéo que vous connaissez, vous avez forcément vu, qui s'appelle Cosmic Eye, qui date de 2018, qui a plusieurs millions de vues sur YouTube, et qui, je pensais, était un moyen intéressant de commencer cette conférence. Je vous ai coupé le son de la vidéo, euh, en partie pour les problèmes de copyright et en partie pour le reste. C'est juste une vidéo qui met à l'échelle, euh, en perspective, euh, ce que nous sommes dans l'univers. Et qui prend des échelles décimales pour montrer <coughs> qui nous sommes, où on en est et à quel point on est incroyablement géant et incroyablement minuscule à la fois. Je pense que vous avez tous ou toutes et tous déjà vu ce genre de d'animation euh, qui se veut le plus réaliste possible, évidemment, avec euh, néanmoins la perspective que ce soit suffisamment visible. Il y en a pas mal sur le net. Euh, j'ai trouvé que celle-là était rigolote et intéressante. Elle est très simple à comprendre et à appréhender. J'aurais pu laisser la musique, mais j'ai pensé que c'était plus délicat pour les oreilles de ne pas la laisser. Elle est un peu lourde, la musique. Bon, et après ça, la vidéo revient dans l'autre sens pour montrer ce qui se passe dessus. Cette vidéo vous donne une, une perspective sur l'espace et ceci, dans vos yeux ébahis, est une perspective sur le temps. Euh, Wikipédia cite euh, Joseph Silk, un astrophysicien, qui dit la théorie du Big Bang est le modèle cosmologique euh, principal et qui prévaut sur tous les autres sur l'existence de l'univers observable depuis euh, les périodes les plus précoces connues auxquelles on puisse remonter, jusqu'à son évolution à très large échelle. Et ce modèle euh, décrit comment l'univers s'est étendu euh, à partir d'un état initial de très haute densité et température, et offre une, une explication compréhensive et, euh, et normalement exhaustive d'un large spectre de phénomènes observés, euh, y compris l'abondance des éléments de lumière, euh, la radiation cosmologique diffuse, le fond cosmologique diffuse euh, diffuse et euh, la structure à très large échelle de l'univers. Quand on compte le temps euh, que met notre planète à faire une euh, révolution complète autour de son étoile la plus proche, qu'on appelle le Soleil, et qu'on la mesure au tropique, on obtient un temps, ce temps on appelle ça une année. Et même si on a à peu près plusieurs dizaines différentes, de définitions différentes de ce que c'est qu'une année, on utilise conventionnellement ce qu'on appelle l'année tropicale, qui fait, comme vous le savez probablement, 365 jours, 5 heures, 48 minutes, 45 secondes. En tout cas, des multiples d'une seconde. Et une seconde, c'est l'unité de base de notre temps aujourd'hui pour le système international, qui est définie, alors il y a longtemps, à partir du mouvement de la Terre, justement, et aujourd'hui qui est égale à... <laughs> La durée exacte de 9 milliards 192 millions, etc., de période de radiation, de transition entre deux niveaux hyper fins, euh, d'un élément non perturbé fondamental de césium 133. Donc ça c'est la définition un peu plus sérieuse et moderne de ce que c'est qu'une seconde. À l'intérieur d'une de ces secondes, ne peut, dans un événement tellement petit qu'on ne peut même pas le percevoir, l'univers a totalement changé et à commencer à se refroidir, à s'étendre, des radiations aux particules, à la recombinaison, aux micro-ondes, à la lumière, à la matière éteinte, aux formes, aux étoiles, aux astéroïdes, à la Terre, à notre planète, aux molécules, aux molécules qui s'auto-organisent, à l'activité biologique, et aux molécules super complexes qui s'auto-soutiennent euh, et qui s'auto-alimentent et qui, so qui survivent d'elles-mêmes, ce qu'on a appelé essentiellement la vie. Oui, la vie, ce petit truc totalement improbable, ce qui inclut nous. Contre toutes les chances, les probabilités, une chance sur des milliards de milliards de milliards, et pour absolument aucune raison, dans tout ce chaos, nous voilà. Et en plus, vous utilisez votre vie à vous pour m'économiser, pour m'écouter moi, <coughs> ce qui fait que vous devez être quelqu'un de très spécial. Le 25 mai 2011, les astronomes ont dévoilé une carte à peu près complète, en tout cas jugée relativement complète par rapport à ce qu'on avait jusque-là, qui n'est évidemment pas complète, loin de là, une médiation 3D de notre univers, ce qu'on appelle l'univers local, c'est-à-dire celui qu'on peut observer, jusqu'à une distance de 380 millions d'années-lumière. Ça a pris plus de 10 ans de créer cette espèce de cartographie. Le 2MRS, le 2Mass Redshift Survey, qui est euh, également connu pour euh, euh, avoir euh, exploré le plan galactique un peu plus loin que les, les études précédentes. Le plan galactique, c'est la région qui est au milieu, là, dans laquelle il y a tout ce qui est la, la poussière, les planètes, les trucs diffus autour de nous, sur la voie lactée, qui fait que, comme c'est en forme de disque, on a beaucoup plus de densité de matière à cet endroit-là autour de nous, et donc on peut moins facilement observer ce qu'il y a derrière, parce que ça bouche le champ de vision. Ceci est jusqu'à preuve du contraire, pour l'instant, euh, la meilleure cartographie qu'on ait obtenu, pu obtenir en fait, euh, en regardant les, les, les longueurs d'onde proches de l'infrarouge et en utilisant des télescopes hautement automatisés euh, en Arizona et au Chili, euh, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'au-delà de ces points, il n'y a absolument aucune chance qu'on puisse ne serait-ce que le voir. Au moment où nous sommes, c'est juste tout simplement trop loin. Si vous y pensez, vous prenez une voiture super rapide et vous atteignez la vitesse assez hallucinante de 299,9 km/h, c'est-à-dire un tout petit peu moins de 300 km/h. Et vous allez dix fois plus vite. C'est plus que deux fois le record du monde de voiture au sol, qui est de 1227 km/h, et vous allez encore dix fois plus vite. C'est trois fois plus rapide que l'avion le, le plus rapide qu'on ait jamais réussi à produire, qui a fait un top à Mach 98, Mach 9.8, ça fait 11 000 km heure. Et c'est à peu près le record euh, pour une fusée habitée à travers l'espace. Si vous montez encore, on atteint à peu près 40 000 km heure. Et c'est exactement le temps qu'il faut pour faire le tour de la Terre, depuis l'espace, en une heure. Ou au sol, pour être plus exact. Euh, vous devriez encore pouvoir aller dix fois plus vite à 300 000 km/h. En, en novembre 2018, euh, la sonde Solar Parker de la NASA a fait une pointe à 530 000 km/h autour du Soleil. 530 000 km/h. C'est l'objet le plus rapide que l'humanité n'ait jamais réussi à produire. C'est au-delà de tout ce qu'on peut imaginer ou voir. 530 000 km/h. Eh bien, on va pousser encore ça. Et on va dire cette fois, on va faire ça non pas en heures mais en secondes. C'est 3600 fois plus rapide et c'est la vitesse de la lumière. À cette vitesse incroyable, maximale théorique d'après les lois physiques qu'on a en ce moment et qu'on utilise en ce moment, même la lumière à cette vitesse incroyable là a mis 46 milliards d'années depuis les confins de ce qu'on a pu jamais observer le plus loin de nous pour arriver jusqu'à nous. 46 et je vous ai dit là, on est sur un univers d'à peu près 380 millions d'années-lumière. Ça veut dire que même à cette vitesse absolument sidérante, il a fallu 380 millions d'années pour que la lumière et les photons émis arrivent jusqu'à nous. Ça, c'est le maximum qu'on peut atteindre aujourd'hui. On ne peut pas aller plus loin que ça. On ne peut même pas récupérer la lumière plus loin que ça. À l'intérieur de cette gigantesque explosion à l'intérieur de laquelle nous sommes, qu'on appelle l'univers, tout n'est pas homogène et tout n'est pas réparti correctement et inégalement. Tout est plus ou moins diffus avec des petits tas de matière à des endroits. Et il y a des gros tas de matière à des endroits, dans des endroits notables, des régions notables, aux limites extrêmes de ce qu'on peut percevoir. Et on appelle ces endroits que vous avez qui sont colorés sur la carte des superclusters. Bien sûr, ça, c'est si on garde dans toutes les directions. Donc notre supercluster à nous est au milieu. Puisque nous sommes au milieu sphérique de ce qu'on peut observer. On est très exactement ici. Et ceci est un supercluster. Ce que vous voyez là, c'est une animation de mouvements supposés et observés à partir des mouvements. De changement de fréquence de la lumière, ce qu'on appelle le blue shift et le red shift, dans ce qu'on pourrait appeler notre super cluster local, c'est-à-dire notre euh, ensemble de galaxies, notre super ensemble de galaxies, ce qu'on pourrait appeler, d'une certaine manière et avec beaucoup de prétention, la maison. Autrement dit, si on mettait une flèche au milieu, on pourrait dire vous êtes ici. Et c'est mouvements que vous voyez, ces trajectoires, sont les trajectoires supposées, qui vont dans deux sens différents essentiellement, celles qui s'approchent et celles qui s'éloignent, de euh, ce qui pourrait s'apparenter à, par exemple, au milieu ici, euh, des mouvements, des mouvements galactiques d'une ampleur assez incroyable, de plusieurs milliards de kilomètres autour de nous. Et ceci est une modélisation qui n'a que quelques années qu'on a réussi très récemment à produire de l'ensemble des galaxies autour de nous. Et vous voyez cette forme assez particulière de notre supercluster. Notre supercluster à nous s'appelle comme vous le voyez sur l'écran, Ce C'est pas n'importe quel supercluster, c'est le nôtre. Et si vous regardez à travers la carte précédente, on a à peine vu quelques petits points. C'est comme ça qu'on a choisi de le nommer, Nanyakea, ça vient de l'hawaïen, et Laniakea, ça vient de lani, le paradis, le ciel, au-dessus de nous, et Akea qui veut dire impossible à mesurer, extrêmement spacieux. On a donné ce nom en 2014, après des mois et des mois de recherche sur la modélisation, comme on l'a vu dans la vidéo précédente, et ça, en quelque sorte, c'est notre super voisinage. C'est l'univers observable et autour de nous, à proche distance, et si on considère que l'univers observable c'était l'équivalent de la Terre, laniakea ça serait un petit pays, quelque part. D'une certaine manière, c'est en expansion, en dispersion, et il est plus que probable qu'en comptant correctement, on arrive à dire qu'on échange des galaxies avec d'autres superclusters qui eux aussi bougent beaucoup. À propos de rien, si vous vous demandez ce que c'est que ce point au milieu. Qui attire beaucoup de choses. Euh, on appelle ça le grand attracteur. Les lignes sur ce schéma ne sont absolument pas une photo, c'est une modélisation, et représentent, je vous ai dit, les blue shift, -shift c'est-à-dire les mouvements des galaxies qui bougent, qui s'en vont ou qui s'éloignent, qui s'approchent. Et on en déduit leur déplacement. Le grand attracteur, si vous voulez avoir une idée de ce que c'est, euh, a l'air d'avoir des influences des millions de fois plus grande que le volume de notre propre galaxie. Si vous avez peur des trous noirs, ceci pourrait être le boss de fin des trous noirs dans vos têtes. <laughs> en général, il est admis que les trous noirs se situent souvent au milieu des galaxies. Ceci est un espèce d'extraordinaire attracteur qui attire des millions de galaxies à la fois. Autrement dit, ça bouge beaucoup et on ne sait pas vraiment ce que c'est. Et tous ces points que vous voyez ici, un peu partout dessus, sont des galaxies. À l'intérieur de tous ces superclusters, il y a des groupes locaux. Et ceci est notre groupe local, qui est fait de plusieurs galaxies. Les plus connues sont la Voie Lactée et la galaxie d'Andromède, qui est juste à côté de la nôtre. On ne sait pas exactement rien que ça, pour vous dire, tout ce qu'il y a à l'intérieur. Une partie entière de tout ça est déjà impossible pour nous à observer. Je ne vais pas vous expliquer comment on fait pour observer ce qu'on n'arrive pas à observer, c'est juste absolument génial ce qu'on sait faire avec de la science, mais voilà. Pour vous donner une idée, ça a un diamètre d'à peu près 10 millions d'années-lumière, c'est-à-dire 9 fois 10 puissance 2 mètres. Et une masse d'à peu près 2 fois 10 puissance 12 fois la masse du Soleil, c'est-à-dire 4 fois 10 puissance 42 kg. Ça fait beaucoup. Mais qu'est-ce qu'une galaxie Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur d'une galaxie Une galaxie, galaxie c'est un... Une liaison euh, gravitationnelle d'étoiles, de restants stellaires, de gaz interstellaires, de poussière et de matière noire, de matière euh, sombre, on va dire en anglais, mais noire en français. Les galaxies s'étendent d'une espèce de taille des galaxies naines, qui font quelques centaines de millions d'étoiles, à quelques centaines de milliards d'étoiles, chacune essentiellement en orbitation autour du centre de masse de sa galaxie. On a donné un nom à la nôtre, parce qu'elle donne beaucoup d'étoiles qui donnent l'impression que c'est blanc avec la lumière, la Voie lactée. Et à l'intérieur de cette galaxie, il y a à peu près 100 à 400 milliards d'étoiles et à peu près autant de planètes. Notre système solaire euh, est situé dans un rayon euh, d'à peu près euh, 27 000 années-lumière à partir du centre de notre galaxie. Sur le bras intérieur d'Orion, une des formes en spirale qu'il y a dans notre galaxie, qui est une concentration euh, de gaz et de poussière. À l'intérieur de ce système, il y a huit planètes et peut-être neuf qui orbitent autour d'une étoile. Il y a aussi cinq planètes naines, 181 lunes et 552 894 astéroïdes recensés jusque-là. Et 14 milliards d'années plus tard, nous voilà. Ça, c'est nous c'est tout nous. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a, tout ce que l'on considère, qu'on sait, qu'on connaît, tout ce qu'on possède, tout ce qu'on a, tout ce qu'on manipule, tout ce qu'on voit, tout ce qui est vivant, mort, qui a été, qui sera, est ici. Je vous recommande au passage de lire le, le, le dialogue, le, le monologue, le speech de Carl Sagan, The Pale Blue Dot, qu'il a écrit et euh, publiquement cité en 1994. C'est brillant, c'est simple, et ça prend cinq minutes pour penser à propos de ce qu'est la Terre. Pour nous, ceci, ici, c'est tout. Toutes les ressources qu'on a sont ici. En dehors de quelques infimes petits tas de poussière, quelques très rares astéroïdes, un peu de radiation cosmique et de la lumière qui vient essentiellement du Soleil, tout est ici. Et ces ressources sur Terre nous ont jamais vraiment coûté grand-chose. Les étoiles sont faites d'éléments chimiques sur la planète et d'une corrélation, d'une chance. Improbable, fantastique d'événements et de faits. La distance entre notre planète et son étoile la plus proche, les formes des étoiles, la forme des planètes, la présence d'eau, le fait que la planète Terre soit tellurique, c'est-à-dire qu'elle soit solide, la présence de gaz à effet de serre, c'est-à-dire justement essentiellement de la vapeur d'eau dans l'air, et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres choses. En gros, c'est ce qu'on appelle la chance improbable que la vie sur Terre ait existé. Et c'est pour ça qu'on la cherche dans l'univers. En 1961, il y a un astrophysicien, un astronome, qui s'appelle Frank Drake, qui a écrit cette équation pour résumer une approximation de ce que seraient les concepts et les critères de ce qu'on pourrait appeler la vie sur Terre et dans notre univers. C'est purement spéculatif, ça peut être critiquable, ça a été critiqué, et ça suppose qu'on peut trouver un autre endroit où la vie aurait évolué jusqu'à le point qu'elle puisse communiquer avec des émissions radio, qui donc peuvent traverser la galaxie. La question est, est-ce qu'on peut en trouver cette équation de Drake que vous voyez sur l'écran, c'est une simple équation qui dit n égale r étoile fois fp, ne, fl, fi, cl, etc. Où n, ici, est le nombre de civilisations dans notre galaxie avec lesquelles une communication pourrait être possible. C'est-à-dire qu'elles sont dans, une, dans notre cône de lumière passée, qui est une notion fondamentale de la théorie de la relativité, je ne m'attarde pas là-dessus, et où r étoile est le nombre moyen D'étoiles en formation dans notre galaxie, où FP est la fraction de ces étoiles qui ont des planètes, où NE est le nombre moyen de planètes qui peuvent potentiellement supporter la vie par étoile qui a des planètes, où FL est la fraction des planètes qui peuvent supporter la vie qui se soit développée jusqu'à un certain point, où FI est la fraction des planètes avec la vie qui ont développé une forme de vie intelligente, ce qu'on appelle des civilisations, où FC est la fraction des civilisations qui ont développé une technologie qui émettent des signes détectables d'existence à travers l'espace, et où L soit la distance à laquelle ces signaux peuvent être émis dans l'espace. Les trois derniers paramètres sont assez difficiles à estimer. Au final, plus N est proche de 1, plus on est à même de trouver un autre monde comme le nôtre. Plus N est supérieur à 1, plus on va en trouver. Et en dessous, ça a l'air plutôt foutu. Les équations de Drake ont proposé des valeurs expliquées, détaillées, en vraiment beaucoup de détails, qui donnent n à peu près égal à 10. 10 civilisations possibles à l'intérieur de la galaxie. De notre galaxie. Et les chiffres, les nombres derrière ça sont très discutés. Ce qui fait que c'est un résultat très très improbable. En 2013, une, une astronome canadienne, Sarah Seager, a proposé une version modifiée pour estimer le nombre de planètes habitables dans notre galaxie. Simplement. Les résultats les plus communément acceptés en général, après avoir retravaillé les nombres, étaient 0,45 planètes dans toute notre galaxie. Et on vient de voir à quel point elle est large en termes de millions d'objets, de milliards d'objets stellaires. On peut se battre sur ces nombres, mais d'une manière générale, vous avez l'idée. Et l'idée, c'est quoi D'une autre manière, ça veut dire que il est très 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 improbable qu'on trouve une autre planète comme la nôtre. À portée technologique. Dit autrement, tout ce qu'on a sur la Terre, c'est tout ce qu'on a tout court. Il y a tout sur la Terre, et il n'y a rien d'autre. Notre planète, c'est tout ce qu'on a. On pourrait euh, arriver avec succès à faire de voyages interstellaires euh, spatiaux plus fort, plus puissant, plus confortable dans les années à venir. Mais il est très 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 improbable qu'on arrive à faire ce bon d'ici 2050. Et pourtant, rien ne nous prouve malgré tout que ce soit même le, la bonne voie. Le cosmos à notre disposition, mais brûler les ressources de plus en plus vite pour s'en aller de la Terre n'a pas l'air forcément super intelligent non plus. C'est un potentiel, mais faut être capable d'y arriver. En fait, on l'a déjà fait. Par exemple, on a dépensé 150 millions de dollars avec un projet qui s'appelle Hayabusa 2 en 2020 pour faire atterrir une sonde sur un astéroïde et rapporter environ 5,4 grammes de matière. Ce qui fait que la tonne de matériaux astéroïdes coûte environ 27 777 milliards de dollars. Et ceci, c'est une image de la sonde au moment où elle se pose sur l'astéroïde. Et ceci, par exemple, c'est Apollo 12, la, la fusée de propulsion pour sortir de l'orbite terrestre euh, au décollage. En 1979, la mission Apollo 12 a rapporté 34 kg de rochers de la Lune. Le coût, calculé avec l'inflation, est environ 3,2 milliards de dollars pour cette mission. Ce qui fait que la tonne de matériaux lunaires de la Lune représente environ 14, 94 milliards de dollars. Et ces missions ont consommé beaucoup plus de matériaux qu'elles en ont rapporté évidemment leur but était scientifique c'était pas du minage évidemment tout ça pour vous dire que tout ce qu'on a à disposition même pour les choses les plus proches et autour de nous déjà et pas plus loin si on devait qualifier ce qu'on a entre guillemets à disposition <coughs> je dirais que c'est facile d'un point de vue historique humain euh, on pourrait dire juste entre guillemets c'est ce qu'on trouve d'un point de vue scientifique, c'est une autre histoire. Cette histoire est en train d'être écrite en ce moment parce qu'on n'a pas encore atteint les limites de ce qu'on sait, loin de là, et on ne sait pas grand-chose. Quand on dit quelque chose qui existe, on pense généralement à de la matière. Les artistes, les physiciens, les philosophes ont tenté d'expliquer et de définir pour nous ce qu'on appellerait la matière. Mais la matière elle-même n'est pas assez. Elle bouge, elle change, elle se reforme, elle disparaît, elle n'est pas inerte. C'est quelque chose qui est à l'intérieur de notre univers et qui est visible. Ce qui fait que aujourd'hui, on passe notre temps à altérer l'état de réalité de la matière. Et pour changer cet état de matière, on appelle ça de l'énergie, qui vient du latin, et qui vient donc du grec ancien, avant le latin, pour dire energia, qui veut dire la force en action. Et comme vous le voyez sur ce schéma, il est très probable que la matière avec laquelle on interagit, qu'on appelle baryonique, ne représente. Pas grand chose pour pas dire seulement 5% de ce que contient l'univers. Le reste, c'est simplement de la matière et l'énergie qui n'est plus assez active pour qu'on puisse interagir avec elle. Autant vous dire, il y a beaucoup de choses assez improbables et inconnues dans l'univers. Alors, l'énergie, qu'est-ce que c'est euh, On utilise ce mot très souvent et on n'est jamais vraiment habitué à chercher sa signification. Aussi longtemps qu'il puisse y avoir eu un univers, il y a eu de l'énergie. L'énergie, c'est la capacité qu'on a à travailler, à produire du travail au sens physique. Tout ce qui a lieu, tout ce qui change, c'est de l'énergie. Le travail, c'est la capacité à changer d'un état à un autre, en fournissant, en transférant de l'énergie, pour être exact. L'énergie, c'est la manière dont on mesure un système physique, c'est-à-dire le système qu'on observe, vers un autre système ou à l'intérieur de ce système. À ce moment, quand il y a des forces qui s'appliquent, de l'énergie est transférée. J'ai bien dit transférée. L'énergie n'est jamais perdue. Elle va juste d'un endroit à un autre. Quand vous quantifiez les changements d'énergie, vous quantifiez l'énergie elle-même. C'est à peu près tout. C'est ce qui anime vos cellules. C'est ce qu'on appelle être vivant. C'est ce qui fait que vos smartphones, vos ordinateurs travaillent en ce moment même. C'est ce qui fait que le signal passe de cette vidéo en live ou en replay jusqu'à vous. C'est ce qu'on appelle de la communication. C'est ce qui fait que le bois, qu'a l'air inerte et qui ne bouge pas, quand vous commencez à initialiser une réaction chimique en lui donnant un peu d'énergie, comme du gaz qui brûle, vous faites en sorte que toutes ces cellules de bois mortes, qu'on appelle la lignine, cassent leur lien entre l'oxygène, le carbone, l'hydrogène, essentiellement, et relâchent de l'énergie, ce qu'on appelle du feu. Ouais, vous l'avez, ça c'est bon. C'est une quantité euh, décente, petite, mais décente d'énergie qu'il y a entre chaque atome. Ça, c'est seulement pour ce qu'on appelle l'énergie conventionnelle, celle que je vous ai montrée sur le dernier slide. C'est seulement pour la matière ordinaire. L'énergie noire est une autre histoire, et on n'a pas vraiment le temps de parler ça aujourd'hui, parce que ce n'est pas le but de cette conférence et de ce cours, mais c'est essentiellement ce qui pourrait être responsable de l'expansion de l'univers. C'est une forme d'énergie sur laquelle on est très activement en train de faire de la recherche. On pourrait parler de ça un jour, c'est très passionnant, mais ça atteint vraiment les limites de la connaissance humaine. Alors imaginez à quel point ça dépasse mes compétences personnelles et celles de beaucoup de monde. Revenons à l'énergie. Il y a deux manières de trouver de l'énergie sur Terre. On peut manipuler des éléments subatomiques à l'intérieur de l'atome, ou on peut manipuler les atomes eux-mêmes à travers ce qu'on appelle les molécules. À propos des atomes, si vous regardez à l'intérieur de chaque atome, il y a ce qu'on appelle un noyau et des électrons qui tournent autour de ce noyau qui sont très mal représentés par cette image sur la droite. Si vous arrivez à faire bouger les électrons en quantité suffisante d'un point à un autre avec un potentiel et une différence de potentiel de électrique donc électronique mais électrique avec les électrons, vous créez ce qu'on appelle un courant d'électrons, ce qu'on appelle l'électricité, qu'on mesure en volts. Si vous cassez et vous assemblez les liens entre différents protons et neutrons à l'intérieur d'un noyau vous relâchez une quantité incroyable d'énergie, ce qu'on appelle l'énergie nucléaire. Si vous regardez votre smartphone maintenant, votre smartphone, et que vous deviez casser tous les atomes à l'intérieur de ce smartphone en même temps, ou tout simplement casser tous les atomes à l'intérieur de vous, de ce qui vous consomme, de ce qui vous constitue vous, et si on faisait casser tous ces atomes d'un coup, on finirait probablement avec un cratère gigantesque de matière en fusion sur plusieurs centaines de kilomètres autour de vous. À plusieurs dizaines de milliers de degrés Celsius. Et ouais, vous avez toute cette puissance-là. Maintenant on peut dire que vous êtes plutôt chaud. Et la masse et l'énergie sont liées ensemble, très profondément. Entre autres choses, les trucs existent parce qu'il y a l'énergie à l'intérieur, parce que les atomes interagissent avec les, uns, les uns avec les autres. Il y a de l'énergie mécanique, électromagnétique, euh, de radiation, élastique, ionisée, gravitationnelle, etc. Pour l'expliquer simplement, euh, d'une manière très simple et critiquable, euh, les atomes interagissent entre eux en fonction de la distance qu'ils ont les uns avec les autres et de plein d'autres facteurs. De quatre manières. La manière que vous connaissez le plus, c'est l'interaction électromagnétique. L'interaction électromagnétique, euh, c'est à peu près tout ce que vous voyez, c'est-à-dire la lumière, les photons, l'électricité, les ondes radio, comme votre téléphone les utilise, les rayons X, le magnétisme, etc. C'est la seule interaction qu'on puisse voir, percevoir à notre niveau avec, d'une certaine manière, la gravitation. La gravitation, de notre côté, est une force extrêmement faible qui est très très étudiée autour. Vous avez peut-être entendu parler des expériences Lirgo et Virgo en 2018 qui ont mis en évidence l'existence d'ondes gravitationnelles résultant de la fusion de trous noirs, etc. Donc vous voyez, la force de la gravitation est extrêmement faible. En... Pour, pour résumer, la, la gravitation, c'est un phénomène naturel qui fait que tout ce qui est de la masse ou de l'énergie, euh, vous, les planètes, les étoiles, les galaxies, sont attirés les uns avec les autres. En 1915, le, la face de notre monde a changé d'une manière extraordinaire. Une des théories les plus avancées, formulée par un des esprits les plus brillants de tous les temps, et très probablement inspirée par sa femme, d'ailleurs aussi qui était brillante, et qui s'appelait Albert Einstein, a énoncé euh, la théorie générale de la relativité à travers quelques papiers qu'il a publiés. Et cette théorie, à travers cette théorie, il décrit la gravité non pas comme une force, mais comme une conséquence de la masse qui bouge le long de lignes géodésiques, qui sont une courbature, une courbure de l'espace-temps, causée par la distribution non uniforme de la masse. Cet exemple, euh, l'exemple le plus, le, plus ex, le, plus, le plus fou qu'on puisse imaginer de cette courbe, cette courbe de l'espace-temps, c'est le trou noir, au-delà duquel rien ne s'échappe, même pas la lumière, une fois qu'on a passé ce qu'on appelle l'horizon des événements, c'est-à-dire que plus rien n'est assez rapide, euh, et l'interaction forte est essentiellement celle qu'on utilise avec euh, l'énergie nucléaire, celle que vous avez ici, euh, et elle est essentiellement utilisée dans les centrales à fusion nucléaire, les centrales nucléaires, les, les, les bombes atomiques et on l'espère d'ici peu aussi les, les centrales à fusion nucléaire. On y reviendra. Et euh, au passage, les atomes se forment ensemble, ce qu'on appelle des molécules, c'est-à-dire plus d'un atome. Ils peuvent être simples, ils peuvent être euh, ce qu'on appelle homonucléaires, comme le, le, di le dioxygène par exemple, qui est juste fait d'oxygène, ou hétéronucléaires, comme le dioxyde de carbone qui est fait de carbone et d'oxygène. Et les liens qui relient les atomes ensemble sont faits d'énergie, d'une certaine manière. Plus un atome est stable, plus les liens entre ce qu'on appelle les nucléons en fait sont forts. Si vous aimez la physique et la chimie, euh, pour regarder les travaux impressionnants de Lavoisier, Proust, Dalton, Bohr, Pauli, vous verrez qu'on a découvert tout ça il y a très 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 longtemps. Et quand on excite des atomes, les électrons qui peuvent bouger des orbites autour d'eux, ils sautent de ces hauteurs d'orbites ce qu'on appelle des quanta. Et vous pouvez les faire réagir, interagir les uns avec les autres. Ils peuvent échanger des électrons et les atomes peuvent même être échangés entre molécules, ce qu'on appelle une réaction chimique, vous vous rappelez à l'école, et les atomes peuvent dans certains cas recevoir des éléments euh, de noyaux ou en perdre, ce qu'on appelle la fission et la fusion. La combustion, le feu par exemple, c'est ce qu'on appelle une oxydoréduction, vous avez étudié ça quand vous étiez ado à l'école, c'est ce qu'on appelle une réaction exothermique, elle génère de la chaleur et c'est essentiellement là qu'on récupère l'énergie dans l'environnement. Voilà d'où viennent l'énergie autour de nous qui fait qu'on est vivant. Quand vous mettez tout ça au bout d'un moment et que vous regardez ce que l'humanité manipule, ça vient pas du tout de l'énergie atomique. La plupart vient de l'énergie moléculaire, les réactions chimiques. Ce qui est moins intéressant, parce que c'est à peu près des milliers, des millions de fois moins fort en termes d'énergie reliée, d'énergie générée, mais ça marche plus facilement, à notre échelle. Et ceci est là où on trouve l'énergie dans le monde. Et c'est avec ça qu'on utilise tout ce qu'on peut pour rester vivant sans ça ça ferait longtemps qu'on serait mort ou plutôt inanimé en tout cas on reviendrait plusieurs millénaires en arrière ce qui croyez-moi n'est pas une expérience que vous voulez essayer comme vous pouvez le voir on a beaucoup changé on vient d'un monde euh, de d'énergie totalement renouvelable euh, où euh, tout était déjà euh, à cette époque vert on va dire d'une certaine manière jusqu'au 19e siècle on va dire et depuis l'époque et depuis l'aube de ce qu'on appelle l'Homo sapiens nous on a utilisé uniquement des énergies renouvelables ce qu'il y avait sur terre c'est-à-dire la plus grande source d'entre elles le soleil le soleil est historiquement ce qui fait que tout est possible sur la terre c'est une étoile ce qui veut dire c'est une bombe thermonucléaire permanente qui fait fondre des protons entre eux des atomes entre eux tout le temps pour créer de l'hélium du beryllium du tritium etc et euh, génère une quantité phénoménale d'énergie. Le Soleil fait 1 400 000 km de diamètre, ce qui fait 109 fois plus que la Terre, et il représente 98% de la masse totale du système solaire. Vous pouvez mettre 1 300 000 planètes à l'intérieur du Soleil, ça fait beaucoup. Une petite fraction de cette énergie traverse l'espace et touche la Terre. N'oubliez pas, c'est la position exacte de la Terre autour du Soleil qui fait que c'est possible, la vie sur Terre. Parmi plein d'autres choses. Quelques kilomètres, quelques millions, quelques milliers de kilomètres en avant ou en arrière par rapport au Soleil, et pouf, il n'y a plus de vie. Parce qu'il y a des gaz autour de, du sol solide de la Terre, il y a ce qu'on appelle une atmosphère. À l'intérieur de ceci, les gaz peuvent se déplacer, ça crée des vents, essentiellement dû à les différentielles températures, et même. Si on y est habitué, il faut savoir que bah, le Soleil ne tape pas sur la planète avec la même force, avec la même intensité, au même endroit. Notamment, c'est plus intéressant au niveau de l'équateur qu'au niveau des pôles. Notre planète tourne, elle a des océans, des montagnes, etc. Et tout ça, ça crée des vents. Notre seconde source historique d'énergie, avec quoi on a créé des moulins à vent. La troisième qu'on a utilisée pour des petits buts au début, c'est la gravitation. La gravité, pour être essentiellement simpliste. En plus du soleil. Le soleil nous permet d'avoir le cycle de l'eau, qui fait que l'eau s'évapore, va se condenser dans l'atmosphère, va tomber sous forme d'hydrométéores sur des reliefs et va revenir dans les océans. Des océans aux cimes, des rivières aux océans, etc. Et donc on a créé des moulins en eau. La source historique euh, d'énergie domestique qu'on utilise depuis le, le début, la plus primitive qu'on puisse trouver, c'est le bois. On a maintenant un peu plus de connaissances sur ce qu'on appelle la biomasse et on utilise un peu plus que le bois. On utilise la décomposition de matière aussi. On a découvert aussi plus tard le charbon en faisant brûler le charbon dans les fours, en le prenant du sol ou des restes de nos combustions non terminées dans les feux de forêt. On a fait pareil avec le pétrole et le gaz naturel en faisant brûler du pétrole dans les fours et puis bientôt dans des véhicules jusqu'à ce qu'on arrive à ce qu'on avait fait aujourd'hui. Ensuite... On a rajouté l'hydroélectricité avec des barrages, en rajoutant de plus en plus de barrages pour retenir l'eau et faire en sorte que la, la gravité fasse récupérer pour faire tourner les turbines, etc. Et ensuite, on a rajouté l'énergie nucléaire avec de la fission atomique. Et euh, ce, à partir de, du seul élément vraiment fissile euh, qu'on trouve sur la surface de la planète, qui s'appelle l'uranium 235. Euh, le plutonium 240, 244 et le californium 254 existent aussi sous forme humaine, euh, et voilà, en gros, on en est là. Et ensuite, on a découvert quelques modes supplémentaires de récupération d'énergie, qu'on appelle l'énergie renouvelable, qui ne le sont pas vraiment, on va voir. Et puis après, à la fin, on a rajouté les biocarburants, qui viennent essentiellement de bactéries, d'algues, de plantes, et de processus de conversion biologique. Comme vous le savez, on a juste rajouté de l'énergie avec le temps, et on n'a jamais cessé d'utiliser les énergies précédentes. On utilise cette énergie pour, dans trois buts essentiellement. Transformer la matière, bouger la matière et fournir l'électricité. L'électricité, c'est la manière la plus convenable d'utiliser le transfert d'énergie parce qu'on n'a pas besoin de bouger quoi que ce soit. Il suffit de mettre des conducteurs d'électricité de et de la transférer d'un endroit à un autre. Le pétrole, c'est la plus convenable pour le transport. Parce que c'est l'énergie qui contient le plus d'énergie, enfin l'énergie primaire, donc celle qu'on trouve dans l'environnement, après l'avoir transformée, qui nous donne le plus d'énergie par masse, par unité de masse, non par poids, avec la gravitation. C'est-à-dire qu'en gros, quand on veut transporter de l'énergie, le pétrole, c'est le plus rentable. Et c'est pour ça que c'est ce qu'on utilise dans les véhicules, parce que c'est léger. L'énergie nucléaire, elle, est très convenable pour s'approcher, sans jamais l'atteindre, de la pollution zéro. Et comme on l'a vu, l'énergie atomique est... Quelques millions de fois plus efficace que l'efficacité mo moléculaire. Euh, mais comme on a payé pour apprendre, l'énergie à fission nucléaire a des échos un peu assombris dans la presse et l'opinion publique, puisqu'il y a eu au total 25 accidents à travers l'histoire et dans l'histoire de l'énergie nucléaire civile. Essentiellement 4 accidents, euh, le complexe nucléaire de Mayak en URSS en 1957, la fusion du cœur de réacteur de Three Mile Island en 1979 en Pennsylvanie, qui aurait dû être l'accident le plus grave, mais qui s'est arrêté juste à temps. L'accident le plus grave, qui est donc la fusion du cœur d'un des cœurs de réacteur de Tchernobyl en 1986 en URSS, aujourd'hui en Ukraine. Et le tsunami qui a euh, coupé les systèmes de refroidissement de la centrale de Fukushima Daiichi au Japon en 2011, qui reste à ce jour la plus grande catastrophe de pollution océanique par le nucléaire du monde. On essaie de trouver de nouvelles manières de récupérer l'énergie. On essaie d'optimiser euh, l'emplacement des maisons, la fabrication des bâtiments, l'isolation, les panneaux solaires, la force marée motrice, les vents à haute altitude, les organismes vivants, les réactions chimiques essentiellement. Mais il y a aussi un grand manque de, un grand manque de, de corrélation entre euh, les sujets qu'on a au quotidien et ceux dont on discute. Euh, je ne sais pas si vous saviez qu'on utilisait autant d'énergie fossile pour vivre aujourd'hui. Ce graphe-là représente la consommation mondiale, mais les données pour les USA, la Chine, la France, l'Allemagne, le Japon, le Royaume-Uni, et n'importe quel pays en haut, euh, des pays classés par PIB, ressembleraient à quelque chose de cette série, évidemment avec des proportions différentes d'un pays à l'autre. Donc aujourd'hui, on est en train d'essayer de remplacer tout ça par de l'électricité. Parce que l'électricité en elle-même ne pollue pas, c'est silencieux, ça transfère, euh, ce transfert ne demande quasiment pas de perte, il y a toujours un petit peu de perte, mais évidemment on a des limites. Euh, ça perturbe pas plus l'environnement que ça, c'est-à-dire les plus hautes tensions ont quelques effets perturbateurs légers sur l'environnement, mais voilà. Au pire on les met des gros câbles dans l'air et au mieux on les enterre sous la terre, voilà, on, les, on les planque. Donc euh, voilà. Faut vous rappeler que par exemple il y a quelques années, il y a longtemps maintenant. La première voiture qui a passé les 100 km/h était belge. On l'appelait la jamais contente, the never happy one. <laughs> Marrant. Cette, car était, cette voiture était électrique. Et l'électricité était déjà bien loin devant tout. Je rappelle au passage que l'électricité euh, pour les voitures électriques est beaucoup plus rentable que les voitures thermiques, puisqu'on récupère beaucoup plus d'électricité d'énergie qu'on stocke pour la transformer en énergie mécanique. Ce qui n'est pas le cas des véhicules thermiques qui en dispersent et en perdent beaucoup. Mais on a décidé de se tourner vers autre chose, quelque chose de plus puissant, les énergies fossiles. Je vous mets cette vidéo et je la commente en même temps. Euh... Cette euh, vidéo représente, depuis 1830 jusqu'à nos jours, euh, les pays les plus puissants, classés par PIB estimé. C'est dur de remonter au bout d'un moment dans l'histoire. Euh par produit intérieur brut, c'est-à-dire par somme de richesses accumulées dans un pays. Ce qui vous voyez ici a été pendant très longtemps dominé par la Chine. Et ça a toujours été le cas à travers l'histoire, talonné par le Royaume d'Angleterre à l'époque qui avait des colonies. Et ceci donc c'est un, un time lapse en fait une une frise historique animée qui euh, nous ramène à cette époque-là. Et vous regardez maintenant là au milieu du 19e siècle jusqu'au début du 20e, soudainement, il y a un truc qui change. Les États-Unis passent devant alors qu'ils n'ont pas du tout du tout du tout la population de ces autres pays. En 1859, Edwin Drake, un ingénieur, a eu comme tâche de forer du pétrole, ce qu'on savait déjà faire et on le faisait déjà pour ses propriétés de combustion. Aussi loin que possible, et son équipe a essayé de le faire en dessous de la surface, à plusieurs dizaines de mètres, et y sont arrivés. Il a ouvert la voie à ce qui pourrait être la plus grosse explosion énergétique dans l'histoire de l'homme l'utilisation massive des carburants fossiles, ce qui veut dire le pétrole et d'une certaine manière le gaz naturel. Le pétrole était plus facile à trouver parce qu'il bouge pas. Le charbon, pardon, a été plus facile à bouger parce qu'il bouge pas. Euh, vous avez juste besoin de creuser et vous récupérez euh, le charbon, vous le ramenez à la surface. Vous allez perdre beaucoup, beaucoup d'hommes et de femmes dans le, processé, dans le processus parce que c'est extrêmement dangereux. C'est putain de dangereux d'aller chercher du charbon sous terre parce qu'il faut creuser assez profond et que c'est extrêmement toxique pour les poumons, la respiration et pour plein d'autres risques. On peut utiliser le charbon tel quel mais on peut aussi le pyrolyser pour obtenir ce qu'on appelle du coke, pas de la cocaïne, hein, ça n'a ça rien à voir. Euh, et on peut le brûler, ce qui est extrêmement efficace et produit énormément d'énergie. Aujourd'hui, on utilise 25 millions de tonnes de charbon par jour. À ce moment, vous voyez sur la frise, l'économie des USA a fait un bond incroyable, et comme vous le voyez, c'est essentiellement grâce au pétrole. Ce qui est ce pourquoi ce pays est historiquement, comme beaucoup d'autres, comme les nôtres aussi d'ailleurs au final, attaché à ce type d'énergie. Et petit à petit, le reste du monde a suivi, et vous le voyez, d'autres pays qui étaient plus modestes se sont mis à devenir beaucoup plus grands, beaucoup plus importants grâce à l'énergie du pétrole. Un baril de pétrole standard aujourd'hui contient 159 litres de pétrole brut. Ça dépend de quel pétrole, mais c'est à peu près ça. On utilise à l'heure actuelle 100 millions de barils de pétrole par jour. 100 millions par jour. Oui, bien entendu. Et dernière édition fossile, l'énergie fossile, vous allez me dire, mais le gaz naturel, on utilise combien C'est plus dur à peser, mais on sait qu'en gros, si on le mesure, on utilise environ 4 millions de mètres cubes par jour de gaz naturel dans le monde. 25 millions de tonnes de charbon, 100 millions de barils de 159 litres de pétrole et 4 millions de mètres cubes de charbon, de gaz naturel pardon, par jour. Ça, c'est là où on en est aujourd'hui. Et vous voyez sur ce graphe, vous reconstituez d'une certaine manière <coughs> l'histoire de notre monde aujourd'hui. Et on arrive à une époque moderne. On a passé ici le premier choc pétrolier réel de l'histoire et euh, visible, celui qui est à grande échelle, 1973. On arrive dans les années modernes, les années 80, les années après la Seconde Guerre mondiale, de boom de population, de boom technologique. On voit ici la reconstitution énorme, la reprise énorme du Japon qui était dévasté au sortir de la guerre, et puis on voit les pays qui sont aujourd'hui au G7 se former petit à petit et reprendre le dessus. Et l'énergie fossile massive commence à être adoptée dans bon nombre de pays. Vous voyez ici de l'Europe, physique, géographique, aussi la Corée du Sud, le Japon, l'Inde, l'Australie. Et si on arrive jusqu'à aujourd'hui, on commence à constater qu'évidemment, euh, Nos amis chinois ne sont pas en reste et vont arriver irrémédiablement, eux aussi, avec leur envergure, à multiplier leur quantité de population, leur surface énorme et la richesse de tout ce qu'il y a dans le sol chinois, pour finalement exploiter le même type d'énergie que les autres pays ont exploité à travers l'histoire. Et tout ceci nous amène à aujourd'hui, en 2021, au moment où je fais cette conférence. Je laisse finir l'animation pour les cinq dernières années. Vous devinez où on en est aujourd'hui. Et spoiler, maintenant, on se dirige vers une quantité d'énergie où la Chine va passer devant les États-Unis et va devenir à nouveau, comme elle a toujours plus ou moins été, le premier pays dans l'histoire euh, à être aussi intense en énergie. Pour résumer ce que ça veut dire euh, en termes d'énergie globale dans le monde, et pour mettre ça en perspective, d'un point de vue euh, énergétique. Vous avez ici l'énergie fossile, c'est-à-dire tout ça utilisé dans le monde. Je dis bien énergie, j'ai pas dit électricité. Tout ça, c'est absolument tout, d'accord Et ce qu'on appelle l'énergie primaire, c'est l'énergie qu'on pioche dans l'environnement. D'accord Celle qui est extraite de l'environnement. L'énergie finale, c'est celle qu'on récupère à la fin. On, on utilise tout ça d'énergie fossile, ceci en énergie renouvelable et ceci en énergie nucléaire. Ceci, c'est ce qu'on obtient aujourd'hui. C'est l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui. Le graphe s'arrête en 2019, il continue de manière à peu près similaire en 2020-2021. Alors maintenant, quand vous voyez ça, vous vous dites, est-ce qu'on est vraiment dans un monde d'énergie renouvelable, d'énergie nucléaire? Moi je crois pas. Et je pense qu'à vue de nez, c'est assez clair. Comme je vous l'ai montré quelques slides avant, l'énergie c'est tout. Donc si on choisit, si on a choisi qu'il y a quelques siècles de tout baser sur une énergie, euh, une espèce de, 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 de centralisation commune qu'on appelle l'économie, on mesure de manière uniforme dans le monde l'économie en PIB, produit intérieur brut. C'est pas tout le PIB, c'est juste un indicateur euh, économique de changement et de valeur à un instant T. C'est un index qui est accepté par les économistes, mais qui évidemment ne représente pas tout, pas grand-chose, et il faut le relier avec plein, 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 plein d'autres indicateurs pour voir si vraiment un pays va bien. Mais ça, c'est un indicateur brut sur une période donnée, par exemple, de, de, de valeur accumulée. Donc s'il faut regarder ce graphe qui représente tous les pays dans le monde, tels qu'ils sont connus par les États-Unis, euh, et le lien en 2016 entre leur PIB en abscisse et l'énergie qu'ils utilisent en ordonnée, vous voyez que les deux sont absolument reliés. Au passage, notez bien que les échelles sont logarithmiques, elles ne sont pas linéaires. Si c'était linéaire, ça serait encore plus flagrant, vous auriez quasiment une droite. Ce que vous voyez ici signifie une chose il y a une corrélation directe entre l'énergie qu'on utilise et le PIB. En gros, l'argent qu'on récupère, la valeur des ressources qu'on a et de ce qu'on a dans un, dans un pays à instant T ou dans le monde à un instant T est une fonction directe de l'énergie qu'on utilise. Et si vous mettiez tout ça dans une perspective globale pour le monde entier et que vous la traciez à travers le temps, vous verriez encore plus qu'il y a un lien clair. Et vous mettiez aussi ce qu'on appelle une droite de régression linéaire ici, pour voir la tendance du graphique. Ce graphique ici nous montre réellement que plus on utilise d'énergie, alors ici vous avez du MTO, c'est des millions de tonnes en, en, en équivalent pétrole. Euh, et ici vous avez le PIB en milliards euh, de dollars constants, c'est-à-dire ramené par rapport à l'inflation, euh, pour avoir une valeur euh, linéaire et pas dire le dollar euh, moyen peut être déprécié ou surapprécié. Euh, je vous laisse deviner lequel des deux est une conséquence duquel. Comme on l'a vu avant, puisque toute l'énergie vient essentiellement de l'énergie fossile, les émissions de carbone qui sont liées à l'utilisation d'énergie fossile sont directement liées à l'économie, de manière exacte, de manière stricte. Je veux dire, vous voyez cette courbe, il n'y a pas moyen de discuter en disant que ça peut être complètement autre chose. Il y a une corrélation directe ici. Et des facteurs qui pourraient être externes, on en cherche, on n'en a pas trouvé. Ça veut dire qu'en gros, l'économie est totalement liée à l'énergie, qui est totalement liée aux émissions de gaz à effet de serre. Totalement. Ok En bas de cette courbe, on est en 1965, en bas à droite, en 2020. Et si vous vous demandez ce qu'on fait avec cette énergie, voilà ce qu'on fait. Si vous, vous cassez en plusieurs. Euh, en plusieurs parties. La, cons la consommation euh, par secteur, euh, on utilise l'énergie pour ça. On crée des matériaux, vous appelez l'industrie, on transporte des trucs, on appelle le transport, on héberge la vie humaine, on appelle ça le résidentiel, et ensuite, il y a... On, tout ce qui fait qu'on autorise tout ce qui on, on, tout ce qui permet d'autoriser ce qui est non matériel mais qu'on n'a pas besoin a besoin dont on a besoin en tant qu'être humain comme euh, les systèmes de santé d'assurance les écoles ou juste fabriquer des sites web et ceci c'est là où vont essentiellement nos sources d'énergie et comment elles sont réparties comme vous le voyez l'industrie utilise à peu près de tout le transport essentiellement du pétrole les bâtiments utilisent essentiellement du gaz et l'électricité. Euh, et voilà faut Juste être au courant de ce que ça peut faire, ça. Et les services euh, se basent essentiellement euh, sur des bureaux qui utilisent donc essentiellement de l'électricité. D'accord À propos de l'électricité, un petit mot on utilise pour la produire essentiellement les principes de Carnot. Euh, on crée de la chaleur on récupère cette chaleur pour faire bouillir de l'eau cette eau crée de la vapeur on fait circuler le, la puissance générée par cette vapeur. Dans des tuyaux, dans des circuits, et on la refroidit à la fin. C'est pour ça que vous avez généralement des grosses cheminées de refroidissement à côté des centrales, qui n'ont rien à voir avec les centrales à énergie nucléaire. Il y a des centrales à énergie nucléaire qui n'ont pas ça, et des centrales qui ont des tours de refroidissement qui ne sont pas nucléaires. Ça veut juste dire que vous êtes près d'une source d'eau, de de, essentiellement une rivière en général. <coughs> Ce qui veut dire que, en fonction de la source que vous avez qui crée l'électricité, on appelle ça l'énergie clean ou verte ou pas. D'accord En fonction de l'uranium, euh, le pétrole, le charbon, les panneaux solaires, etc. Mais comme je vous ai dit déjà, spoiler, on a un problème. On a un gros, un énorme problème catastrophique. Les hydrocarbures, comme le pétrole, le gaz et le charbon, sont formés à partir de la décomposition de plantes et d'animaux anciens, qui sont morts depuis longtemps. Ils sont utilisés pour tout pour la production électrique, le carburant des avions, pour créer de la chaleur, pour les matériaux médicaux, pour créer du plastique, pour créer des matières premières chimiques. Les hydrocarbures sont des molécules organiques qui consistent essentiellement en du carbone et de l'hydrogène. Le pétrole brut et le gaz naturel sont des dépôts d'hydrocarbures formés largement, très largement, à partir de l'enfouissement, de l'enterrement de plancton marin mort, alors que le charbon est plutôt formé à partir de plantes qui s'est accumulée et qui a créé des bassins subsidiaires qui sont généralement tassés et enfouis dans le sol par le temps et qui vont, sous le, sous le sol, sous la planète, perdre leur eau progressivement pour se sécher. Tout ça, c'est essentiellement une conséquence de la tectonique des plaques, la collision, la subduction essentiellement, qui vont faire en sorte d'enfouir sous le sol très profondément pendant des millions d'années certains éléments qui étaient à la surface de la planète autant vous dire c'est quelque chose qui est assez lent jusqu'à un point où c'est assez profond sous la terre je vous rappelle qu'on gagne quelques degrés quand on descend de quelques dizaines de mètres donc ça va très vite puisque le centre de notre planète est à plusieurs centaines enfin très vite on va dire la centaine de degrés parce qu'après on descendra pas plus loin euh... et tout ça se passe très lentement. C'est comme ça que les carburants fossiles se sont formés et c'est pour ça justement qu'on appelle ça fossile parce que ce fait c'est fait à partir de fossiles. Ce procédé-là, il prend des centaines de millions d'années, entre 20 et 350 millions d'années pour le pétrole. Il se passe en continu en ce moment, mais on va creuser beaucoup trop vite sous la biosphère le temps que ça se recrée. Quand on le dit d'une autre manière, en fait euh, ces carburants-là sont d'une certaine manière renouvelables, mais beaucoup trop lentement. Ce qui est actuellement en fait finalement une, une manière de se sauver pour nous, parce qu'on va avoir un problème beaucoup plus gros que ça. Vous voyez, aujourd'hui, on utilise essentiellement l'énergie fossile comme source d'énergie, et vous vous dites peut-être, mais alors où est-ce qu'elle va cette énergie finalement Pour faire quoi On s'en sert pour faire quoi On a vu les secteurs totaux, mais plus précisément, euh, le problème c'est que Grâce à cette concentration d'énergie et à quel point c'est facile de la récupérer, on n'a jamais payé pour ça au passage d'ailleurs, euh, la nature a juste créé ça avant que l'Homo sapiens existe. Euh, on considère que l'énergie n'est pas un problème. Du coup, l'énergie, ça veut dire que c'est 5 à 10% de nos coûts en moyenne euh, journaliers. Euh, même moins si vous êtes très riche ou si vous, si vous êtes à la tête d'une société de service euh, qui n'a pas vraiment besoin de bâtiments ou de transport. Comme on le fait d'ailleurs dans le secteur du numérique, on ne consomme pas vraiment d'énergie nous-mêmes en fait. Tout ce qu'on fait, euh, on ne le voit pas. Si on ne travaille pas dans un data center, on ne voit pas vraiment l'énergie qu'il faut pour nous. Et une société moyenne, publique, privée, une structure, en fait, ne regarde pas vraiment ses consommations d'énergie, ses factures, c'est pas vraiment un sujet. Sauf que l'énergie, pour nous, c'est absolument tout. Absolument tout. C'est pas un choix, c'est de la physique. C'est comme ça que fonctionne l'univers, c'est comme ça que nous on fonctionne, et c'est comme ça que des millions de machines qu'on a créées, qu'on a créé, travaillent pour nous chaque jour. Ce qui fait que nous, ici, assis confortablement à la maison ou ailleurs, dans un endroit sympa, au lieu d'être détruits et ravagés par le fait de travailler dans des champs ou de l'industrie ou dans des mines aujourd'hui, c'est ce qui fait qu'on voyage plus que certes plus que quelques dizaines de kilomètres euh, autour de nous dans une vie. C'est absolument tout. C'est tout pour nous, cette énergie. Et pourtant... On a pensé qu'on avait résolu cette contrainte, parce qu'on n'a jamais payé pour rien, et que ce serait jamais un problème et que ce n'était pas quelque chose qu'on considérait comme très grave. Mais si je vous dis par exemple que les roues d'une voiture font à peu près 1% de leur poids, qu'est-ce qui se passe avec une voiture si on lui enlève ses roues Est-ce que ce 1% n'était pas critique Pas plus que par exemple l'air conditionné Votre sang à vous, qui circule dans vos veines, fait à peu près 8% de votre poids total. Ma graisse à moi <laughs> représente à peu près le même la même quantité, d'accord J'ai regardé mon indice de masse corporelle. À votre avis, lequel des deux je peux à peu près... Euh, de, enfin enlever de manière à peu près sûre et certaine sans avoir de problème de santé derrière, le sang ou la graisse en trop. Vous voyez, le problème c'est que le pourcentage, le partage des choses, le prix qu'elles coûtent n'est pas forcément lié à la valeur qu'on leur apporte. Et ici, vous voyez qu'on émet des gaz à effet de serre à peu près... Avec tout ce qu'on fait. Essentiellement du dioxyde de carbone, mais pas que. Le méthane aussi, et que autres gaz, et certains autres gaz comme celui qui sont dans les frigos pour refroidir, etc. Mais on réchauffe l'atmosphère, on fait en sorte que la vapeur d'eau s'évapore plus, qui est le plus gros gaz à effet de serre de la planète. Et du coup, on va avoir cet effet de serre encore plus. Tout ce qu'on fait aujourd'hui, utiliser des camions, des trains, des avions, faire du ciment, fabriquer des maisons, avoir des complexes industriels, avoir des vaches, avoir des champs, Pêcher, produire des TV, produire des éviers, des pneus, des fruits, en cultiver de manière agricole et non complètement naturelle, les micros avec lesquels je vous parle, couper des arbres, fabriquer de l'acier, des pianos, des lits d'hôpital, des posts Instagram, tout ça, de manière directe ou pas, génère des gaz à effet de serre au final. Et pourquoi est-ce que c'est un problème Alors je vais vous expliquer pourquoi c'est un problème. Si vous regardez ceci, c'est la composition de notre atmosphère, qui est à peu près une enveloppe, une petite peau autour de la Terre, comme ça, d'à peu près 1000 km autour de notre planète. Elle se situe généralement entre moins 417 mètres, ce qui est le milieu de la mer morte, le point le plus bas sur Terre, et euh, plus 8849 mètres, qui est le sommet du mont Everest, dans les montagnes de l'Himalaya en Népal. Donc dites-vous que, sur ce graphe, nous sommes à l'extrême absolue, extrême gauche du graphique, sur l'axe des ordonnées. Donc nous sommes là, dans les premiers mètres, pour ne pas dire kilomètres au maximum. Si vous ne vous rappelez pas de vos cours de chimie, le N2 c'est du diazote, le dioxygène ici, ça c'est de l'argon, et après il y a le reste. Okay voilà ce qu'on a dans l'atmosphère. Après pour le reste il y a quelques trucs euh, qui nous concernent vraiment, notamment de la vapeur d'eau. Euh, du dioxyde de carbone, CO2, et du méthane, CH4. Alors, l'eau, vous connaissez, parce que tout ce qui respire, on rejette. Parce que l'océan en évapore, et à les cours d'eau un petit peu aussi. On en a besoin de 3 à 4 litres par jour, y compris l'eau qui est inclue dans la nourriture, ou sinon on meurt. Vous connaissez le dioxygène, parce que c'est ce qui fait que sur, euh, tout ce qui respire sur Terre, on a besoin. On s'est adapté à notre monde. Et c'est pour ça qu'en dessous de 18% de dioxygène dans l'air qu'on respire, on commence à suffoquer et on meurt. Vous connaissez le dioxyde de carbone parce que tout ce qui respire en émet et tout ce qui fait de la photosynthèse en absorbe. À notre altitude, l'atmosphère contient à peu près 0,04% de dioxyde de carbone. Au-dessus de 1,5%, on commence à suffoquer. Au-dessus de 3%, on ne peut pas garantir que vous puissiez survivre plus de 15 minutes. 3% de dioxyde de carbone. Vous savez que si vous restez confiné dans une pièce sans ventilation pendant un certain temps, vous commencez à avoir des migraines, vous le savez déjà. Et bien essentiellement, ces migraines viennent de deux choses bon, une déshydratation, souvent, mais très souvent aussi du CO2 qui commence à s'accumuler dans une pièce. Vous pouvez vous aussi avoir entendu parler du CH4, méthane, parce que c'est ce que les vaches rotent toute la journée en mangeant de l'herbe, mais aussi à partir d'une certaine manière, de la production de pétrole, des eaux usées et de pas mal d'autres choses. Le méthane, au-dessus de 5%, on est en danger immédiat de mort si on n'en respire plus de 5% dans l'atmosphère. Donc première chose à savoir, tous ces gaz sont directement mortels, directement, juste en les inhalant. Et les proportions ne sont pas délirantes. Hein. Mais comme on va le voir, tout ce qui est à la surface de la Terre modifie sa surface, son climat, et les ressources qu'on utilise ont des conséquences directes et indirectes incroyables. Avant d'aller plus loin, juste une question. D'où vient l'énergie qui arrive sur la planète Ceci là, c'est un tableau qui a été revu en 2017. On a calculé euh, des estimations et des, des intervalles de valeur et d'erreurs évidemment de mesure des sources identifiées d'énergie que la biosphère, c'est-à-dire la couche de vivant autour de la Terre, euh, récupère. Ça a été essentiellement axé autour des États-Unis, mais euh, la quatrième ligne qui est ici euh, est la même pour le reste du monde. Elle varie juste en fonction du pays. Voilà. Elle ne fait pas beaucoup de différence. Au pire, elle va aller beaucoup plus bas que ça. Donc comme vous le voyez, il y a à peu près, à peu près, 99%, quelque chose, de l'énergie qu'on récupère sur Terre qui vient du Soleil. Rien d'autre. Absolument. rien rien d'autre. Donc le Soleil envoie de l'énergie à travers l'espace. Et cette énergie, en fait, elle a frappé notre planète en continu depuis qu'elle existe. Le Soleil est un petit peu plus vieux que la Terre, quelques millions d'années avant, 4,55 et 4,6 milliards euh, d'années. Et c'est cette source d'énergie qui à la fois est notre salut, qui devrait aussi nous concerner toutes et tous. Euh... Parce que il y a beaucoup plus que ce problème-là. Si on s'arrête cette illustration de deux minutes, on regarde un petit peu ce qui se passe. La surface du Soleil est à peu près à 5500 degrés et elle répand de l'énergie atomique, essentiellement par le spectre visible et la radiation proche de l'infrarouge, jusqu'à 150 millions de kilomètres de distance jusqu'à nous. La Terre a un écosystème très fragile qui distribue la chaleur. Essentiellement reçu au niveau de l'équateur, parce que notre planète est presque parfaitement sphérique, en direction des pôles. La radiation solaire sur le sol est d'à peu près 1360 watts par mètre carré. Ce qui veut dire qu'à l'étendue au bout de vos doigts, la portée de vos bras, si vous en avez deux, et que vous capturiez toute l'énergie qui arrive sur cette surface carrée ou arrondie, si vous voulez, pendant une heure, vous pourriez faire tourner un frigo toute la journée. Et la Terre fait 510 millions de mètres carrés. Ça fait beaucoup, beaucoup d'énergie qui arrive. Énormément. Mais si on gardait cette énergie de manière infinie, on finirait juste par brûler. Toute la surface deviendrait réchauffée de plusieurs centaines de degrés. Regardez Vénus par exemple. Mais c'est pas ce qui se passe. Parce qu'une partie de cette énergie est renvoyée dans l'espace. D'abord. Parce qu'une partie est radiée émise sous forme de radiation vers l'espace depuis le sol aussi à nouveau sauf pour une toute petite fraction qui à travers les âges pour plein de raisons a changé cette petite fraction elle est due à la présence de gaz dans l'atmosphère qui sont opaques aux radiations qui arrivent sur la terre mais euh, aux radiations pardon qui sont émises de la terre mais qui sont légèrement transparentes aux radiations qui viennent de l'extérieur c'est-à-dire qu'elles sont plutôt transparentes aux rayons de soleil et quand, avec l'activité humaine, on augmente les proportions de ces gaz, on crée ce qu'on appelle abusivement l'effet de serre. Ce qui ne marche pas vraiment comme une serre, mais c'est comme ça qu'on s'en rappelle, c'est l'essentiel. Les gaz, qui sont très, très, très disséminés un peu partout dans l'atmosphère, sont relativement rares dans l'atmosphère, à un point qu'on parle de parties par million. C'est vous dire si vraiment c'est très fin. Une toute petite partie de ces gaz, en plus ou en moins, et tout sur la planète change. Et ceci, c'est le plus gros des dangers et le premier des dangers auxquels on doit faire face aujourd'hui. La différence entre les radiations émises reçoit, par le Soleil qu'on reçoit et les radiations émises par la planète Terre en tant que planète, c'est ce qu'on appelle le forçage radiatif. Cool. Et le forçage radiatif, en ce moment, il en est où Ceci est un graphe de la température et de la variation de température à la surface de la Terre. Depuis le, la fin d'une ère qu'on appelle le Pléistocène, jusqu'à l'ère dans laquelle nous sommes aujourd'hui qu'on appelle l'Holocène, et on va se diriger vers l'Anthropocène, puisque maintenant, il est acté que le principal facteur de changement géologique à la surface de la Terre, c'est l'homme. Pour vous dire si on commence vraiment à devenir influent, et pas forcément dans le bon sens du terme. Depuis moins 12 000 ans, enfin moins 10 000 ans à gauche, jusqu'à plus de 1000 ans de notre ère, c'est-à-dire notre époque, à droite. La surface de la Terre se balade au niveau température et le climat se balade dans des événements cycliques récurrents de réchauffement et de refroidissement qui sont vraiment très durs à prévoir tout simplement parce qu'ils ne sont absolument pas réguliers. Là c'est juste quelques milliers d'années mais si je vous montrais sur un million d'années vous verrez que c'est absolument pas régulier. Et on n'a même pas encore réussi à complètement modéliser les raisons pour lesquelles euh, ça a lieu et comment on fait pour savoir si le climat va changer en plus ou en moins à travers l'histoire, même en ayant des observations, à travers notamment des transformés de Fourier. On n'arrive pas encore à savoir d'où ça vient. Ça vient essentiellement de considérations astronomiques où les objets célestes ont une influence sur la Terre, sa position, son orbite, son inclinaison, ce qu'on appelle sa mutation aussi. Il euh, y a beaucoup de choses qui se passent et qui font que la planète n'a pas un mouvement, une existence régulière à travers l'histoire. Donc on a des périodes d'augmentation et d'instabilité climatique, ou de refroidissement et d'instabilité climatique aussi dans le sens à travers l'histoire. Mais ce que vous voyez sur cette image est relativement clair et sans précédent. On devrait se diriger vers une période de refroidissement léger, et on va en réalité vers une période de réchauffement extrêmement fort et brutal. Beaucoup plus qu'on ne l'a jamais expérimenté sur la planète. Et beaucoup plus qu'on ne l'a jamais étudié ou trouvé. Et pas dans la bonne direction. En d'autres termes, on se dirige vers un changement climatique extrêmement intense qui prend la forme, essentiellement, d'un réchauffement climatique. Ceci vient de ce qu'on a appelé sur le slide précédent le bilan radiatif de la Terre. C'est la différence entre l'énergie qu'on reçoit de l'espace et l'énergie qu'on redit, qu'on renvoie vers l'espace, ce que je vous ai montré sur le slide précédent. Et qu'est-ce qui se passe si on continue de la même manière que celle avec laquelle on agit aujourd'hui bah, C'est à vous de voir. Ceux-ci, ce sont des scénarios, scénarios différents, retenus par l'IPCC, l'Intergovernmental Panel on Climate Change, qu'on appelle le GIEC en français, un corps international créé par les Nations Unies pour surveiller le climat et publier tout ce qu'ils peuvent trouver sur le sujet. Comme vous pouvez le voir, d'ici moins de 70 ans, on va faire face à une augmentation d'environ 5 degrés en moyenne sur la planète Terre. Tout ça, lié au coupable essentiel de cette augmentation, le CO2, le dioxyde de carbone. Rappelez-vous, il y a d'autres considérations que le dioxyde de carbone, mais c'est lui qui fait référence et on va généralement tout convertir en équivalent dioxyde de carbone. Donc vous regardez la concentration atmosphérique de CO2 qu'on s'attend à trouver la surface attendue, la température attendue à la surface de la Terre et vous avez plusieurs scénarios qui conduisent à plusieurs versions différentes des courbes, des calculs et des prévisions de l'extrapolation par rapport à ce qu'on a aujourd'hui. Et si vous pensez qu'on est en train de ralentir ces émissions vous allez devoir réfléchir à nouveau. Tous ces modèles sont pris dans le rapport du GIEC euh, Long Term Climate Change, Projections, Commitment and Irreversibility au 12 e chapitre, si vous allez voir dedans, c'est des gros documents de plusieurs centaines de pages. Et comme vous pouvez le voir, peu importe le modèle que vous prenez, si vous pensez que ces courbes vont vers le bas, c'est moi qui vous dis je pense que vous devez voir un 9 tellement alors oui on devrait être en train de décroître au niveau des émissions de gaz à effet de serre et de co2 essentiellement et au lieu de ça non seulement on n'agit pas pour stabiliser mais en plus on augmente et c'est pas tout quand je dis décrémenter décroître redescendre au niveau des émissions vous pourriez vous dire bah si on arrête les courbes ici vont irrémédiablement redescendre à zéro Rapidement. Là aussi, il faut penser différemment à nouveau. Le dioxyde de carbone est une molécule très stable. On a vu au-dessus ce que ça voulait dire, c'est-à-dire que les liens chimiques sont très forts. Et on a passé notre temps à oxyder du carbone dans les combustibles carbonés. En d'autres termes, on a créé de plus en plus de CO2. Et c'est comme ça que vous divisez les sources d'énergie, celles qui sont basées sur le carbone et celles qui sont basées sur le, la connaissance nucléaire, atomique ou renouvelable derrière. Le soleil, le vent, les marées, la gravité, etc. À propos des énergies carbonées, peu importe ce que vous faites, il s'agit de brûler pour récupérer l'énergie. Conduire, canaliser la chaleur, je vous l'ai dit, pour faire bouillir de l'eau, etc., la faire circuler, etc. Ça active en général des turbines. Qu'on appelle un alternateur, un turbogénérateur, un turbo en français. C'est ce que vous trouverez dans toutes les centrales, que ce soit euh, alimenté par euh, de l'eau qui tombe ou qui plonge, ou que ce soit alimenté par euh, la chaleur. D'accord Donc c'est ce qui se passe par exemple dans le cas des barrages avec la gravité, ou c'est ce qui se passe dans le cadre des trucs qu'on fait chauffer, où l'eau va tourner de cette manière-là. Mais tout ce qu'on fait brûler pour récupérer l'énergie, relâche du carbone dans l'atmosphère. Et le carbone, c'est simplement, je vous l'ai dit encore une fois, l'élément principal sur lequel on devrait se focaliser. Il y a beaucoup d'autres produits chimiques dans l'équation, la combustion, mais ce n'est pas notre sujet ici. Et ce gaz reste dans l'atmosphère très, très, très longtemps. Et on n'a aucun moyen de le faire redescendre et de l'emprisonner au sol ou dans les océans. N'oubliez pas qu'il peut être aussi beaucoup dans les océans à nouveau. La seule chose qu'on peut faire pour l'instant, c'est attendre. Le meilleur moyen de récupérer le CO2 de l'atmosphère et de le capturer pour le remettre dans le sol, c'est la base des réactions chimiques vivantes des, de la végétation sur Terre qui, vous vous en rappelez, s'appelle la photosynthèse qui utilise en fait des photons et de la matière pour synthétiser différentes matières que celles qui va au début essentiellement du CO2 et de l'eau, H2O, pour générer du dioxygène et tout ce qui sert à la plante à vivre à l'intérieur. C'est pour ça que nous vivons un peu en symbiose avec elle. Les deux tiers de la photosynthèse sur Terre et de la capture du carbone, de la capacité en capture de carbone, viennent des arbres. On estime qu'il y a à peu près 60 000 à 100 000 arbres différents sur Terre capables de faire ça. En fait, comme vous voyez, si on voulait simplement réduire la concentration en carbone, en dioxyde de carbone de l'atmosphère de 50%, il faudrait qu'on attende à peu près 70 ans. Si on voulait éliminer 80% de ce qu'on rejette, il faudrait attendre 1000 ans. Et à 10 000 ans d'attente, il en restera encore à peu près 10 à 15%. Dans d'autres termes, vous ne serez plus jamais jamais à même de connaître le climat de 2021 après 2021. Et c'est ce qui se passe depuis les 20, 30, 40 dernières années. Et c'est ce qui va se passer aussi dans les 10 prochaines, 20 prochaines années, même si on arrêtait immédiatement tout maintenant. Ceci, ça illustre l'urgence absolue dans laquelle on est. Autrement dit, on s'est beaucoup menti à nous-mêmes en disant qu'on agissait pour les générations futures, ce qui est absolument faux. On est en train d'agir pour nous-mêmes à très court terme, immédiatement. Si vous essayez d'imaginer ce que c'est que le changement, Essayez de regarder ceci. Ceci, ce sont des simulations basées sur les conséquences, telles qu'on vient de les voir, le changement climatique. À gauche, vous avez le changement minimal, qui en gros veut dire tout le monde fait ses efforts au maximum pour limiter le réchauffement à 2 degrés au-dessus de la moyenne d'il y a 150 ans, 191 ans. À droite, vous avez le scénario le pire qui est calculé, c'est-à-dire le business as usual, c'est-à-dire on continue comme aujourd'hui. Donc non seulement on fait la même chose qu'aujourd'hui, mais en plus on croit légèrement comme aujourd'hui. Et ça représenterait le 90e centile en français euh, des, euh, de pas de changement en fait dans ce scénario, c'est-à-dire on, change, on changerait absolument rien. Ce qui veut dire en gros, on garde la vitesse et le, le, le rythme actuel. Souvenez-vous que ces estimations sont datées de 2014. Le prochain rapport du GIEC aura lieu en 2000, sera donné en 2022 l'année prochaine euh, au moment de cette conférence. Et comme vous le voyez. Euh, si vous avez des euh, accroissements de température au sol, exprimés en degrés Celsius, on arriverait à peu près à plus 4,9 degrés, on va dire plus 5, ce qui voudrait dire en moyenne plus 12 degrés au niveau du sol, en moyenne. Ça veut dire qu'en pic, on peut arriver à deux fois ça. Si vous imaginez vos pires canicules que vous avez connues au là où vous habitez, vous rajoutez encore en moyenne 12 degrés et vous rajoutez en pic plus que 12 degrés, parce que c'est une moyenne. Ça veut dire potentiellement 20 degrés de plus. Ici, par exemple, où moi j'habite à Limoges, il fait 42 degrés en 2019 en pic. Je vous laisse imaginer ce que ça peut donner d'avoir 62 degrés au sol. En bas, vous avez les précipitations, on appelle les hydrométéores, qui sont mesurées annuellement en moyenne. Quand la température monte, l'eau au sol se vaporise, s'évapore beaucoup plus vite. En conséquence, l'atmosphère devient plus humide. On l'a vu tout à l'heure, ça veut dire qu'il va y avoir plus de vapeur d'eau dans l'atmosphère, qui est le principal gaz à effet de serre. Bon, la planète est bien gérée, quand il y a plus d'eau dans l'atmosphère, elle redescend plus vite sur la planète Terre, et les plantes aiment bien ça. Ça veut dire plus de précipitations, de neige, de brouillard, etc., qui devra d'abord être redistribuée. Et comme vous le voyez sur le schéma en dessous, elle va aller à des endroits très spécifiques, pour des raisons complètes que je ne vais pas détailler. Au milieu, vous avez la bande équatoriale, une ligne imaginaire qui partage le pôle sud et le pôle nord, et à proche de cette latitude, la position du nord et du sud euh, sur la Terre, vous avez des températures et de l'humidité qui vont monter de manière extrême. Comme vous le voyez, ça s'étend assez loin, ça s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres voire milliers de kilomètres. N'oubliez pas que nous sommes des êtres nous humains si on considère rien d'autre comme vivant qu'on ne pense qu'à nous, des êtres homéothermes. Ça veut dire qu'une simple petite déviation de température de la température interne et notre corps est en danger de mort. 3 degrés de différence dans un sens ou dans l'autre, c'est la mort assurée. Quand nos corps homéothermes font face à de la chaleur excessive, ils évacuent autant qu'ils peuvent en respirant, en transpirant, et puis un peu plus loin avec la radiation de chaleur et la conduction, en touchant des objets ou quelque chose de la matière qui soit moins chaude que nous. Euh, et vous avez vu pendant les crises de chaleur qui sont montées à 50 degrés derrière des grandes vagues de chaleur, des gens être plaqués au sol contre du béton, de la roue, du goudron à l'ombre pour essayer simplement d'évacuer leur chaleur vers le sol. C'est la dernière chance qui vous reste avant la mort, et quand vous en êtes là, c'est que la mort est vraiment pas loin. Ça veut dire aussi que quand l'air devient plus humide, le seuil de température critique s'abaisse. C'est en général aux alentours ce qu'on appelle de 35 degrés de TW, de thermomètre mouillé. Ce qu'on appelle le thermomètre mouillé, c'est une, 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 une température euh, d'ampoule mouillée, si vous voulez, euh, qui est un index composite qui utilise à la fois l'humidité et la température. Parce qu'effectivement, en fonction de l'humidité ambiante, pour transpirer ou pas, donc pour la conduction de chaleur, la température létale mortelle autour de nous change. Elle commence à 35 degrés et elle descend très vite en dessous. Donc autrement dit, à ces endroits-là, il va faire plus chaud et plus humide. On sera moins résistant à la chaleur et à l'humidité. Si vous voulez le dire d'une autre manière, ça va devenir impossible de vivre à l'intérieur de ces zones. Impossible. Sans un refroidissement permanent, exothermique autour de vous, un exosquelette, tout ce que vous voulez, ou des conduits, des tunnels ou vivre sous terre, vous serez mort en quelques heures, pour ne pas dire en quelques minutes, à la surface de la terre à cet endroit-là. Maintenant, en sachant et en se disant que ces zones, ces régions sont peuplées de centaines de millions de personnes, qu'est-ce qui pourrait se passer Ça, je ne peux pas vous le dire, j'en sais rien. Mais je peux vous dire que ça a un rapport avec l'actualité. Je peux vous dire que c'est un rapport avec les gens qui perdent leur esprit, qui commencent à chercher des ennemis autour d'eux, qui voient leur situation personnelle se dégrader, celle de leur pays, de leur région se dégrader. Des gens qui, en constatant la baisse d'activité économique, le déplacement de population, Deviennent racistes, xénophobes, les mouvements, les agressions, les vols, les viols, les contractions économiques, les difficultés pour les gouvernements à équilibrer les budgets et pour les sociétés à stabiliser leur activité. Autrement dit, c'est un facteur d'instabilité totale énorme. La Banque mondiale estime que le changement climatique pourrait causer 140 millions de déplacements de personnes, rien qu'à l'intérieur de leurs propres frontières, d'ici 2050, dans l'Afrique sous-saharienne, l'Asie du Sud, l'Amérique latine, avec des sévères, sévères conséquences sur le développement économique. L'histoire se répète. Quand on fait face à des menaces qui n'ont pas de visage, qu'on ne peut pas nommer, qu'on ne peut pas voir, on devient très créatif pour leur donner un visage, qui n'a rien à voir avec ceux qui sont les responsables. Quand l'énergie se contracte, l'économie se contracte, les vies au quotidien deviennent affectées et le stupide, l'idiot à l'intérieur de nous se réveille, juste avant que l'animal en nous se réveille, et à ce moment-là, les choses changent. Si vous voulez encore des conséquences dramatiques, devinez quoi Elles sont toutes liées et en cascade. Ce qui veut dire que tout était relativement équilibré à la surface de la planète et qu'on casse cet équilibre. Donc les conséquences dramatiques que je vous ai montrées ont encore plus de conséquences dramatiques qui elles-mêmes vont les augmenter. Un exemple, la glace, la, 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 la calotte glaciaire permanente sur les pôles est en train de fondre. Les animaux migrateurs ne pourront plus migrer, ils vont mourir. La biodiversité est en plein en pleine chute libre en ce moment. Les plantes ne s'adapteront jamais assez vite, les animaux non plus. On a perdu 68% des espèces vertébrées entre 1970 et 2016 sur le monde, à la surface de la planète. Les arbres vont mourir parce qu'ils n'arriveront pas à repousser assez vite. Même si on arrête la déforestation, demain. Et quand les arbres vont mourir, ils ne vont pas repousser assez vite. Donc moins de carbone capturé, donc encore plus d'augmentation de température dans la, enfin à la surface de, de la Terre. Ce qui veut dire aussi qu'ils vont s'assécher, puisque la pluviométrie va changer. Les feux de forêt sauvages vont commencer à éclater partout, en Canada, au Canada, en Russie, partout. Le pôle Nord est en train de brûler comme l'Australie aujourd'hui. L'Europe du Nord, par exemple, va devenir comme l'Afrique aujourd'hui, idem pour la Sibérie, idem pour les États-Unis. Et toutes les forêts vont brûler plus rapidement que les forêts du sud de la Méditerranée. Si vous pensez que c'est fini, c'est toujours pas fini. Il n'y a jamais eu une seule semaine depuis 2010 sans qu'on ait trouvé et découvert une nouvelle conséquence de nos actions sur le futur. Chaque semaine, on projette de nouvelles conséquences dramatiques. Il y a 3-4 semaines, j'ai vu un article passé qui expliquait à quel point l'assèchement des sols argileux sous le sol, qui était considéré comme négligeable au-delà d'une certaine distance, va devenir plus les rendre plus instables et les faire que de plus en plus de sécheresse souterraine allaient avoir lieu et que les bâtiments allaient s'écrouler encore plus vite. Ceci à gauche, c'est une, une attente euh, visualisée en fait de production de nourriture marine. Qu'en plus c'est de cette couleur là, ici là, c'est dramatique. A vous de voir à quel endroit c'est dramatique. Ce qui est sur la droite, c'est une attente, un résultat attendu de production agricole. Le mot dramatique ne doit pas suffire non plus, je pense. Face à une augmentation de la population, si tout le monde se met à moins pouvoir produire qu'avant, on va avoir un vrai problème. Et pour la première fois dans l'histoire moderne, un pays, Madagascar, a fait face à une famine exclusivement causée par le réchauffement climatique. 400 000 personnes se dirigent vers une famine. 1,5 million de personnes vers ce qu'on appelle de l'insécurité alimentaire. Ça veut dire qu'ils ne sont pas capables et pas à même de trouver de la nourriture à chaque fois qu'ils en auront besoin. Ces images sont des vraies images qui ont été prises il y a quelques semaines. Les gens, comme vous le voyez, ont commencé à manger des fleurs de cactus et des criquets morts qu'ils trouvent par terre. On est dans un état d'esprit qui fait qu'en général, on va refuser de considérer le danger. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point la catastrophe est avancée et ça a déjà commencé. Il y a des décennies. On le dit tous les jours dans les news, mais on n'agit toujours pas, parce qu'il faut pour ça changer nos modes de vie. Ça va être très compliqué, parce qu'on ne le voit pas venir. Ce n'est pas sous notre nez. On voit juste deux, trois petits pics de chaleur, de froid de temps en temps. Et c'est très lentement, trop lent pour nous encore, pour que nous, on puisse notablement voir, percevoir les changements. Alors on reste aveugle. Et j'espère qu'après cette conférence, vous serez moins aveugle. Les changements sociaux... Vont suivre les changements climatiques, qui eux-mêmes vont suivre les changements de crise énergétique. Tout est lié ensemble et en cascade. Il ne reste qu'une seule question pour vous combien de temps Combien de temps avant que ça nous atteigne, nous J'ai des news, et elles sont pas très bonnes. C'est déjà là. Pour la première fois, en Colombie-Britannique, en British Columbia, au Canada, on a atteint cette année un record incroyable de 49,6 degrés Celsius. Qui a été enregistré le 29 juin 2021 à Letton. Ça, c'est une image de l'Ontario, de l'autre côté du Canada, en 2020. Ça, c'est Kartnoyarsk, en Russie du Nord, près du pôle Nord, en 2019. En ce moment, en Sibérie, au moment où je fais cette conférence, pour contenir les 300 feux de forêt, les pompiers ont estimé qu'il fallait aligner 2000 km de lignes de contenance. C'est-à-dire qu'il allait falloir aligner 2000 km de personnes qui travaillent nuit et jour pour arrêter ça. Ça, c'est l'Australie en 2020. Le 9 mars 2020, il y a des feux qui ont brûlé approximativement 18,6 millions d'hectares. Ça fait 186 000 km². Qui ont détruit 5900 bâtiments, dont 2779 maisons, et ont tué au moins 34 personnes. Cette photo-là, c'est pas une photo d'époque recolorée, c'est les couleurs exactes qui étaient celles qu'on voyait au moment où la, couleur, la photo était prise sur les plages, c'est-à-dire là où il n'y a plus rien à brûler, au bord de l'Australie. Il y a à peu près 3 milliards, 3 milliards de vertébrés terrestres, l'essentielle majorité étant des reptiles, qui sont morts ou qui ont été affectés. Et d'après les premières attentes d'études qu'on a aujourd'hui, il se pourrait que bon nombre d'espèces en danger sont devenues aujourd'hui en voie de disparition définitivement en Australie. Ça, c'est Lion Head. C'est la montagne qui est à côté de Cape Town en Afrique du Sud en 2019. Ça, c'est Braga, au Portugal, en 2017. Les feux soudains qui ont ravagé le Portugal pendant le feu de forêt le plus mortel qui ait jamais lu en juin 2017 ont tué 64 personnes, en en blessant 250 de plus. L'Office national des forêts du Portugal a dit que les feux de forêt avaient ravagé environ 200 000 hectares juste en 2017. Ça, c'est en Turquie. Il y a à peine quelques jours, en août 2021, et je vais vous montrer cette vidéo. Je suppose que la plupart d'entre vous ne parlent pas grec. Alors, je vous donne un trans une transcription. Ça s'est passé en Eubée, une île grecque, il y a quelques jours, pendant l'été 2021. À ce moment, une bonne partie de la Grèce est en train de brûler. Il y a quelques semaines. C'est toujours le cas aujourd'hui. Ils sont en train de faire un dernier reportage sur les derniers endroits qui n'ont pas encore été touchés par les feux de forêt. Et la reporter qui est à gauche propose à la personne de prendre un masque, non pas pour le Covid, mais pour euh, filtrer l'air au maximum autour. Et lui propose à son équipe de prendre des masques et de les ramener avec leur camion. Elle lui demande pourquoi il est encore là. Et vous l'entendez à sa voix, il a un grave problème respiratoire, il ne peut pas s'en aller. Alors elle cherche des masques, elle demande à son équipe d'en trouver dans leur sac. Elle lui dit, on vous emmène, venez avec nous. Le feu arrive de ce côté-là. Et elle lui dit, venez avec nous. Et il lui répond, pour aller où αλλά... Δεν ευχαριστώ, δεν κλαίτε, σας παρακαλώ. Είναι, κυρίες και κύριοι, πολύ δύσκολες και οι στιγμές. Είναι απολύτως ανθρώπινο αυτό που βλέπουμε. Είναι ένας μεγάλος άνθρωπος. Προσέξατε τι είπε πριν. Δεν φοβάμαι για τον εαυτό μου, φοβάμαι για το σπίτι μου. Νομίζω ότι πρέπει να αφήσουμε χρόνο και... Elle a tweeté quelques heures après pour expliquer un peu plus ce qui était il a été abandonné par sa famille, qui est parti avec les derniers véhicules qui restaient, et lui, il est resté. Comme vous le voyez, tous les gens qui vont devoir bouger par des suites de conséquences climatiques ne le feront pas par plaisir personnel, et ne vous laissez jamais influencer parce que les gens vont vous dire que c'est un confort de changer de pays, de langue, et de quitter là où on est grandi. Et comme vous le voyez, d'un autre côté, tous les gens qui sont forcés à se déplacer ne le feront pas. Si vous le voulez dire d'une autre manière, ça va être très dur d'être dans la divination pour dire on va comprendre et modéliser ce qui va se passer. Ça va être très dur de dire où vont aller les gens. Ceci, c'est un screenshot que j'ai pris de Google Maps de la vallée de la Vésubie à Roquebillière en France. C'est une région qui est très connue pour des épisodes, des épisodes extrêmement violents de météorologie qu'on appelle les épisodes méditerranéens. Quand ça se passe dans les Cévennes, on appelle ça les épisodes Quand des conditions météorologiques très particulières se passent, comme notamment quand la température à la surface de la mer Méditerranée augmente, en conjonction avec des vents côtiers qui donc vont venir très fortement pousser. L'évaporation de l'eau vers les côtes, donc le vent vers le continent, il peut se passer parce qu'on est à côté d'une zone très très pentue où on a les Alpes, des montagnes très hautes qui se qui touchent vraiment la mer. C'est-à-dire qu'on monte de quelques centaines de mètres en faisant quelques kilomètres de distance. Donc d'un coup, il y a un barrage et il peut tomber jusqu'à une année entière de pluie en une seule journée. C'est un équivalent méditerranéen d'une mousson. Ça a lieu toutes les quelques années et de plus en plus souvent. Mais le 2 octobre 2020, malgré le fait d'avoir été averti, invité par les voisins à quitter cette maison qui est située près de l'île d'une rivière qui a l'air inoffensif, le couple de retraités qui était à l'intérieur n'est pas resté très longtemps pour la simple et bonne raison que ceci s'est passé. Ça, c'est une vidéo qui a été prise par un journaliste qui suivait les secours, juste à côté de la rivière en crue. Les couples de retraités qui étaient à l'intérieur ont utilisé les torches qui leur restaient pour envoyer un signal de détresse à travers la fenêtre, parce qu'ils ne pouvaient pas crier, personne ne les entendait. Je vous ai pas mis la vidéo d'après. Vous devinez ce qui se passe. Le caméraman a dit j'arrête de filmer, ce sera plus simple. La maison est emportée et ils sont morts devant les yeux de tout le monde y compris des pompiers qui étaient à côté et qui n'avaient rien d'autre pour, pour aller sauver ces gens. J'ai inclus ce slide euh, pour les amis, les gens autour de moi que je connais qui sont français et qui pensent toujours que ça a lieu en dehors de leurs frontières. Je pourrais faire ça pour n'importe quel pays. N'oubliez pas qu'on a battu en 2019 le record de chaleur avec 45,9 degrés en France métropolitaine dans le Gard, ce qui est totalement au-delà de n'importe quelle température saisonnière. J'ai une amie que j'aime beaucoup. Sa famille habite à quelques kilomètres à l'est de cette maison, dans la prochaine vallée, où se sont passés exactement les mêmes événements. Je suis resté avec elle à parler un week-end entier sur Instagram et Facebook Messenger, en essayant de regarder les news et les médias, en étant relativement concerné de mon côté. Tout ce qui se passe est déjà à notre porte et depuis longtemps, et on a été consensuellement averti depuis plus de 50 ans. Chaque année, quand on bat les records de, majorité de chaleur sur la majeure de la planète, sur les océans. N'oubliez pas, quand il s'agit de la température seulement, pour ne parler que de la température, on est simplement à plus 1,09 degrés au-dessus de la température moyenne à la fin du XIXe siècle. 1 degré. Mais on vient d'avoir pour 5 années consécutives les températures les plus fortes sur la planète depuis 1850. Quand je dis tous les pays, je pourrais dire partout. Et les océans ne sont pas non plus en reste. Comme vous le voyez, peu importe où vous allez sur la planète, il y aura des augmentations de température. Et par la nature des flux de chaleur, la température va plus s'accroître sur la Terre que sur les océans. Et si vous pensez en termes de statu quo et de 4% de croissance, on arriverait à un forçage radiatif de plus 8,5 watts par mètre carré sur le globe, qui nous amènerait à, on l'a dit tout à l'heure, à peu près 5 degrés. Donc vous pouvez vous attendre à ce que ça double sur la Terre et ça dédouble en plus par rapport aux océans. Et comme c'est une moyenne, à nouveau, vous pourrez vous attendre, dans les deux cas, à des pics dans les deux sens. Probablement pire que ça. Un dernier truc qui est super intéressant pour nous. C'est que toutes ces conséquences peuvent être réversibles ou pas. Par exemple, la circulation méridienne de retournement atlantique, c'est le facteur de circulation principal de la circulation atlantique, océanique, atlantique. Ça distribue la chaleur sur la planète avec un impact majeur sur le climat, en fonction des différences de température, donc de la concentration en sel, euh, des marées, etc. Et. C'est la manière avec laquelle la chaleur qui arrive au centre de la planète, au niveau de l'équateur, sur l'océan Atlantique, va être poussée vers les pôles. Et il apparaît que le changement climatique l'affecte et le ralentit. Vous avez entendu parler des fontes de la calotte glaciaire, ce qu'on appelle la cryosphère, qui font d'à peu près 87 000 km depuis 1976 en moyenne. Je ne vais pas vous faire toute la liste, euh, le, le clarate de méthane qui est emprisonné dans les anciennes glaces, en fait, et qui, va être, euh, qui vont fondre et qui va libérer tout ce méthane à nouveau, les forêts qui meurent à travers le monde, les sécheresses, etc. Il y a une seule chose qui est sûre avec toutes ces conséquences, elles s'escaladent et elles s'impactent les unes avec les autres. Et elles génèrent encore plus de conséquences dramatiques. Par exemple, la chaleur... Euh Réchauffer le temps va faire des arbres moins résistants et incapables de s'adapter assez vite. Donc ils vont arrêter de pousser, de se reproduire, ils vont commencer à brûler naturellement. Mais quand ils le font, je vous l'ai dit tout à l'heure, ils capturent moins de carbone. Et l'océan, c'est pareil. Donc devinez quoi Moins d'arbres, moins de carbone, moins de carbone capturé, moins d'arbres, moins d'arbres, moins de carbone, etc. Ça peut aller longtemps en cascade. Alors ok, ça n'a pas l'air euh, d'être génial tout ça. Vous dites, on a juste à prendre des solutions. Et on est bon. En général, dans notre monde, il y a toujours une solution hyper évidente, super facile à mettre en place, et après, on ne sait pas pourquoi, on s'amuse à créer des débats entre, d'un côté, euh, les possédants, les capitalistes, les patrons, les politiques, les gens de pouvoir. Et euh, on voit uniquement notre monde à travers la compétition, en disant, attention, est-ce qu'on ne va pas menacer euh, non pas notre stabilité économique, mais notre progression économique. Et d'un autre côté, on a... Euh, Soi-disant des citoyens éclairés et sages. Et on se dit, après tout, des bâtons. Bah, la nouvelle, c'est que cette fois-ci, c'est pas le cas. Du tout. D'abord, il est trop tard pour discuter de ce à quoi on fait face. Il est même trop tard pour trouver des solutions absolues qui fonctionnent à tous les coups, qui soient majeures et globales. En vrai, on n'a pas de solution. Et le peu qu'on a aujourd'hui sont à peine en train d'être mis en place. Mais alors vous me dites, pourquoi est-ce qu'on a fait ça pourquoi euh, est-ce qu'on en est arrivé là Pourquoi on ne vient pas en arrière Ça, c'est une euh, peinture de Alonso Sanchez Cuello, un peintre espagnol. C'est daté de la fin du XVIe siècle à Séville, en Espagne. Et ceci, c'est plus ou moins ce à quoi ressemblait notre monde, ou ressemblerait notre monde, si on n'avait que des énergies renouvelables et des matériaux renouvelables à disposition. Et qu'on creusait raisonnablement dans les ressources non renouvelables. À cette époque, l'espérance de vie n'est que quelques décennies. Elle est en moyenne de 27 à 28 ans, en Espagne ou en France. Inutile de vous dire que la moitié d'entre vous et moi devraient déjà être morts, au-delà de l'espérance de vie. Ça serait la même chose pour moi d'avoir 37 ans à l'époque que d'en avoir 108 aujourd'hui. À cette époque, je serais probablement mort il y a plus longtemps. À cette époque, il n'y a pas de réelle connaissance de la médecine, il n'y a pas de réelle manière de prévenir la souffrance, pas d'anesthésie, il n'y a pas vraiment de loi contre le viol, contre le meurtre. La justice était très très loin de ce à quoi on peut penser aujourd'hui. À cette époque, on se relâche, on fait, on, on chie, on pisse partout dans des seaux, dans la rue, on laisse les dents pourrir, on les arrache on tape en tapant dessus. Autant vous dire qu'à cette époque, il n'y avait pas grand chose pour ne pas dire rien. Alors non, les gens ne vivaient pas une vie heureuse. Pas du tout. Du tout, du tout. En tout cas, c'est certainement pas ce qu'ils ont écrit dans les bouquins et les écrits qu'ils nous ont laissés. Alors pourquoi est-ce qu'on a fait ça Pourquoi est-ce qu'on a arrêté d'utiliser nos capacités génétiques pour à la place utiliser, assembler, exploiter, animer toute cette énergie, tous ces matériaux Tout simplement parce que c'est beaucoup plus convenable et intéressant et qu'on a en fait créé un mode de vie beaucoup plus joyeux et beaucoup plus agréable, appréciable à travers ça. Vous voyez, ceci, cet homme, c'est Robert Forstmann, un athlète national qui a été multiplement médaillé, champion européen, champion du monde de cycle sur piste. Ses jambes font 74 cm de diamètre, enfin de, de tour, pardon, pas de diamètre de circonférence. Sur cette vidéo que vous pouvez trouver en YouTube, il a réussi avec un équipement spécial à produire 700 watts en 1 minute 48 secondes. Ce qui a permis au grille pain, qui était attaché sur un stockage d'énergie vide au début, de griller une tranche de pain. C'est l'équivalent de 0,021 kWh. Et comme, par exemple, le corps humain, je vous l'ai dit, est tomé au terme, on doit rester à température constante, quelques degrés et on meurt. Le corps humain peut générer jusqu'à 100 watts au maximum. Si ce cycliste faisait une montée en vélo d'environ 2223 mètres à pied, pardon, on va prendre à pied, ce sera plus simple. Disons qu'il pèse 90 kg au total avec ses fringues et un sac à dos avec de l'eau il pourrait générer 0,4 kWh d'énergie. 0,4 kWh. Tout ça, euh, mettons qu'il le fasse seulement avec des guillemets sur un kilomètre par jour, chaque jour, il produirait environ 100 kWh d'énergie par an. 100 kWh d'énergie par an. En montant et en descendant, un kilomètre de dénivelé, pas direct pour une escalade, en, en marchant avec des marches, avec la route, par jour, tous les jours de sa vie. Il produirait 100 kWh. D'un autre côté, 1 un litre, un litre de gasoline, enfin d'essence, de, contient l'énergie équivalente à 8,9 kWh d'électricité. Ce qui veut dire qu'en gros, vous produiriez la même énergie que cet être humain a produit en toute une année avec seulement 11 litres d'essence. 11 litres. Je vis en France, on utilise en moyenne 1000 litres d'essence par an. L'année dernière en France, on a utilisé 42,5 millions de litres de carburant. Quand on met tout bout à bout, c'est-à-dire l'essence, le diesel, le fioul, le kérosène, etc. Et cette énergie, elle est gratuite. On n'a jamais payé pour que le pétrole existe. On a simplement payé les salaires, les taxes et les coûts arbitraires des humains qui ont été l'exploiter. On n'a pas besoin de créer le pétrole. C'est pourquoi on rentre dans une crise énergétique, ce qu'on va dans une minute, et rajoutez à ça, si vous voulez une idée, que le coût du pétrole conventionnel est à peu près 3 à 10 centimes par litre. Autant vous dire que, par rapport à ce qu'on vient de fournir comme énergie, on n'a pas spécialement envie, supposé qu'on utilise du pétrole pour faire chauffer des grippins, ce qui n'est pas le cas, d'utiliser des énergies comme ça. On se dirait pourquoi se fatiguer quand c'est aussi simple que ça. D'accord si vous voulez comparer, euh, en termes d'énergie, si on casse tous les atomes d'uranium 235 contenus dans 1 gramme d'uranium, c'est-à-dire à peu près 0,72% d'un gramme d'uranium, on génère 158,5 kWh. Vous voyez la différence. Mais voilà le truc. Euh, en 2019, un humain consommait en moyenne 9700 kWh par an en moyenne. Ça monte jusqu'à 200 000 par an au Qatar, 180 000 en Islande, 80 000 aux USA, pour ne parler que des pays qui consomment le plus. Il y en a qui consomment beaucoup moins que ça. En d'autres termes, en moyenne, un être humain produit 0,2% de l'énergie qu'il utilise chaque année. Vous, moi, tout le temps. C'est exactement pour ça que depuis le XVIe siècle, on est passé à ce à quoi on est passé aujourd'hui. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en moyenne, vous, moi, n'importe qui ici, il y aurait 500 êtres humains qui travailleraient pour vous, pour que vous puissiez avoir votre vie en moyenne aujourd'hui, en ce moment même, pour faire tout marcher, pour que vous ayez un ordinateur, une pièce, une maison autour de vous, ce qu'il y a dedans, les freins que vous portez, les produits que vous utilisez, vos lunettes fabriquées, ce que vous voulez, tout ça, tout ça, tout ce qu'il y a autour de vous. Ça représente en moyenne lissé le travail de 500 êtres humains en continu. À chaque fois que vous prenez un trottoir, une route pour rouler, un véhicule, un smartphone, que vous mangez de la nourriture, que vous allez aux toilettes, que vous dormez dans un lit, chaque chose a été faite en utilisant cette énergie. Sans ça, on serait à poil, dehors, dans les terres sauvages, en train de mourir à l'âge de 20 ans, et on prendrait 100% de notre temps où on n'est pas malade, où on ne dort pas, à survivre. Ce qui veut dire qu'il faudrait 3 950 milliards d'êtres humains sur la planète juste pour nous fournir l'équivalent énergétique à partir d'énergie humaine pour le monde de vie qu'on a en moyenne sur la planète Terre aujourd'hui. Ça, c'est sans considérer le reste, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi qu'ils dorment et qu'on les nourrisse. Et qu'on leur donne un toit. Et ceci... C'est ce pourquoi on brûle la planète aussi vite, sans réaliser à quel point on va aussi vite. Et si vous vivez dans un pays riche, dit développé, j'ai des mauvaises nouvelles. Vous tirez cette moyenne de 500 vraiment vers le haut. Ça peut monter jusqu'à 1000, 2000 fois euh, l'équivalent de, de votre d'un être humain, voire plus, si vous, vous avez une vie de riche derrière. Maintenant, vous comprenez pourquoi on utilise du pétrole. Du gaz naturel, du charbon, etc., à la place du travail et de la force humaine. C'est juste superisé à trouver sur la planète. C'est à disposition, on peut le stocker, on peut le transporter. Le pétrole, par exemple, ça pèse euh, centi... enfin, 0,88 grammes par litre et ça fait marcher les machines. Et les machines ne font pas d'émeutes comme les esclaves. Euh, elles ne créent pas des syndicats, elles ne vont pas se battre pour leurs droits, elles ne deviennent pas malades. Elles n'ont pas besoin de mourir de, 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 de l'hôpital, etc. Elles, se, elles peuvent être réparées, elles peuvent être améliorées, elles peuvent être changées et jetées sans éthique. En tout cas, c'est ce qu'on pense. Et donc, du coup, euh, en ce moment, toutes les machines sur Terre qui travaillent avec du charbon, du pétrole, etc., etc., sont si confortables pour nous. Et c'est pour ça euh, qu'on a en moyenne 500 êtres humains qui travaillent pour nous sur la planète sans arrêt. C'est pourquoi si vous pensez qu'il va falloir revenir en arrière dans le temps en regardant, en considérant notre, notre, notre utilisation de l'énergie, vous allez devoir considérablement réduire, vous comme moi, tout le monde, notre qualité de vie. C'est ce pourquoi les gens, les gouvernements, les industries, les sociétés, les individus comme vous et moi, ne sont pas super, super contents de cette découverte. Si vous considérez les connaissances et la recherche qu'on a fait aujourd'hui, euh, qui sont phénoménales sur les ondes gravitationnelles, euh, l'apprentissage profond, le boson scalaire de Higgs, euh, ça n'affecte pas vraiment vos vies au quotidien. Alors que ça, ça change complètement vos vies et comment vous considérez le monde et votre futur. En tout cas, c'est ce que vous pensiez. Mais c'est pas du tout vrai. C'est pas à propos de votre futur. C'est à propos de vos années, de, de vos, des 70 dernières années écoulées. Et de votre présent maintenant. Pour cette conférence, je ne vais pas creuser trop dans les conséquences de la révolution énergétique, mais quand je vous dis simplement, ça va changer tout, ça va littéralement changer tout. Qu'est-ce que ça a changé d'arriver à produire autant de machines Ben, ça a changé, par exemple, euh, qu'on s'éloigne un petit peu de notre mortalité de nos besoins fondamentaux animaux euh, on a commencé à travailler dans les services donc on est devenu de plus en plus inutile en tant que force de travail dans un monde qui utilise toujours je le rappelle le travail comme fondation comme fondement social de référence donc ça explique beaucoup de crises sociales à l'heure actuelle sur terre toute la vie trouve ses ressources et existe à partir des matériaux inertes puis à partir de la mort des autres moi, en tant qu'animaux, on est formé à partir d'atomes qui viennent de la mort des trucs qu'on a ingérés. Quand la vie a besoin de ressources, elle attend des organismes morts ou elle les tue. On est des animaux, on est vivants aussi, on n'est pas une exception. Si vous regardez n'importe quel livre, blog, vlog ou publication historique, vous verrez qu'il y a des centaines de millions de morts euh, qui sont liés à euh, notre activité. Et vous n'avez pas idée de combien de personnes... En plus, peuvent devenir euh, désespérés à cause de notre partie animale. Vous seriez surpris à quel point les vols surprises euh, qui ont été pris sur le fait, la famine, les guerres des ressources pour la bouffe, la nourriture, l'alimentation, l'eau, etc., les accidents pendant les vols, etc., tellement de vies ont été perdues sur Terre juste à cause de l'animal qui est en nous. Alors, quand les machines travaillent pour nous, vous n'avez pas besoin de travailler, vous baissez votre taux de mortalité. En conjonction avec euh, des recherches médicales qui avancent, vous avez une explosion de la population. Vous connaissez le graphe, je vous le remets pas. Vous savez à quel point il y a une explosion de la population ces dernières années. Quand vous euh, satisfaites le, 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 les besoins humains, la chaleur, l'énergie, la matière qui rentre, et qui sort, les gens n'ont aucune raison de se battre ou très peu. Il vous reste après ce qui est plutôt néocortical. Euh, la matière, l'art, euh, la folie, les dérèglements psychiatriques, mais aussi les désirs. Euh, essentiellement, tout ça, une fois que le reste est nourri, il vous reste un peu la partie néocorticale qui s'exprime. Et quand vous divisez le nombre de personnes qui travaillent dans l'exploitation primaire des ressources de la planète, euh, vous augmentez la quantité de machines. Donc il y a de moins en moins de personnes dans les mines, dans les champs, plus, plus personne pour aller couper du bois pour aller chasser, pêcher, récupérer des ressources d'eau, etc. En Union européenne, par exemple, le secteur primaire, c'est 4,7% de l'emploi. Contre 75%, il y a à peine 3 à 4 générations. Ça représente seulement 2% du PIB. Essayez d'enlever ce secteur juste pour voir combien de temps vous tenez. Combien de temps le monde va tenir sans secteur primaire, sans matériaux, sans alimentation. Juste parce que respirer c'est facile, ne veut pas dire qu'on peut s'en passer facilement. Ensuite, il y a le secteur secondaire de l'économie. Celui qui consiste essentiellement à transférer, euh, qu'on a transféré essentiellement d'ailleurs au passage des pays riches vers les pays pauvres, hein, parce que voilà, on n'a pas envie d'avoir la souffrance, euh, la tension, la pollution, les, les travailleurs qui meurent, etc. Tout ça, bon, voilà, on a délégué aux pays pauvres maintenant, ce qui fait que les pays euh, dits développés ont beaucoup abandonné ce secteur. Par exemple, en Union européenne, sur toute l'Union Européenne, c'est en moyenne 18% c'était beaucoup plus avant, hein. euh, à la fois 18% d'emplois et 18% de PIB. Et tout ça, à nouveau, est remplacé par des machines et en décroissance. Les travailleurs, les ouvriers, ont été en déclin en termes de proportion depuis des décennies. La proportion. Donc tous ces gens euh, s'éloignent de ces secteurs, ceux qui vivent à ces époques-là, euh, nos prédécesseurs, nous, aujourd'hui, euh, dans ces pays, on s'éloigne de tout ça. On se rassemble dans des villes de plus en plus grandes. Et dans ces, dans ces villes, on, va vivre dans, on travaille dans des services. On travaille essentiellement aujourd'hui dans des services. 70 à 80% du secteur tertiaire dans les pays qu'on appelle développés et qui ont fini leur transition démographique et euh, industrielle. Ça veut dire qu'à peu près aujourd'hui, vous avez 50% du monde qui habite dans 2% du territoire total. Et on s'attend que ce soit 70% en 2050. 50% du monde qui vit dans 2% du territoire. Avec toutes ces, re ces ressources. On a commencé à parasiter ce qui était il y a longtemps un substitut pour nos besoins naturels. En haut de quoi, au sommet de quoi, on a construit ce qu'on appelle une économie. Et dans cette économie, on a commencé même à détacher les besoins des structures. On appelle l'économie euh, réelle. On a commencé à quitter l'économie réelle parce qu'on a besoin de moins en moins d'humains. On s'est retrouvé à de faire de plus en plus rien, de plein de manières. Plus les pays étaient pauvres, plus les gens travaillaient, plus ils mouraient jeunes et moins ils avaient le temps de s'occuper de leur vie. Et au final, au sommet de tout ça, on peut empiler de manière euh, géniale tout un tas de trucs vachement utiles comme l'actionnariat, le business angelism, euh, la marchandisation, la mondialisation, les échanges boursiers, la spéculation, euh, les banques d'affaires, euh, les levées de fonds. Euh, le high frequency trading, le trading on fréquence, euh, puis au petit à petit, voilà, les dark pools, enfin, ce que vous voulez. Les, les chaînes YouTube super utiles, avec des mecs avec des casquettes qui montent des graphiques toute la journée pour vous dire sur quoi investir, les crypto-monnaies, euh, euh, les gens avec des cravates et des, et des nœuds papillons, euh, des très grosses casquettes, euh, les bouteilles de vin connectées, euh, les employés de ressources humaines en freelance, les happiness managers, les quality managers, enfin, tout un tas de trucs super utiles pour l'humanité. Ce qui, vous en doutez et quelque chose euh, dont on avait désespérément besoin pour construire notre monde. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça ben Parce que personne n'a jamais dit à ces gens de ne pas le faire. Quand tout le monde se retrouve avec du capital gratuit, donné, qu'on trouve par terre, c'est-à-dire ou des ressources ou des machines dans des sous-couches de la société en dessous de là où on est qui inconsciemment vont travailler pour nous, qu'est-ce que vous pensez que ces gens vont faire, que nous, que moi, que tout le monde fait bah, je vous dis, c'est assez fou hein, ce que le cerveau humain peut faire quand il commence à manquer d'occupation. Dans l'autre sens, qu'est-ce qui va se passer si on estime et qu'on projette sur les conjonctures euh, ce qui va se passer depuis on va dire, les années 70 jusqu'à aujourd'hui Tout ce qu'on sait, ce que je vous dis, c'est que ça sera de plus en plus instable. Je ne vais pas lister toutes les conséquences, mais si vous avez euh, l'occasion de lire des contenus historiques, n'importe quel livre d'école même, au niveau élémentaire, conviendra, euh, et que vous regardez l'histoire lue à l'envers, mais, évidemment, avec une technologie supérieure et une connaissance supérieure, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver Eh bien, vous allez pouvoir vous retrouver face à tous ceux dont on essayait de s'échapper et de, 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 de ceux dont on a de s'éloigner. Regardez autour de vous, qui est-ce qui est en charge en Turquie Qui est en charge en Russie Qui est l'ancien président des États-Unis qui a été élu entre 2016 et 2021 Qui est aux portes de gouverner des pays comme l'Italie la France, l'Autriche, qui est en charge en Angleterre du pouvoir Quel est l'état actuel des tensions sociales ne pensez pas qu'il y a une montée progressive euh, et une diversion euh, des structures de crise euh, que personne qui soit élu ne peut changer sans risquer ses carrières et sa vie Est-ce que vous êtes sûr vous n'avez pas entendu et parler de mouvements de population récemment, de conflits intérieurs, d'obscurantisme elle est comme la situation en ce moment au Moyen-Orient, au Pakistan, en Birmanie, en Afghanistan, au Brésil, en Chine, en Inde. Quand les approvisionnements énergétiques se contractent, l'économie se contracte. Quand l'économie se contracte, personne ne peut dire d'où viennent les problèmes et les gens deviennent, je vous l'ai dit tout à l'heure, fous. Et ils commencent à s'inquiéter, à voir du mal partout. C'est un peu comme si vous étiez giflé en continu toute la journée sans que personne que vous aviez jamais d'où ça vienne. Au bout d'un moment, vous allez commencer à, à incriminer n'importe qui et à imaginer des coupables qui n'existent pas. Quand on est touché, en, quand on a mal, quand on est blessé, on a une réaction animale de repli. On se met souvent en position latérale de sécurité, dans un coin, le, là où on peut. On met les mains par réflexe là où le lieu de la douleur vient euh, pour protéger l'endroit. On se replie et on repousse les gens autour de nous. C'est exactement ce qui se passe à large échelle. Les frontières deviennent renforcées, les tensions montent, les gens cherchent des boucs émissaires et des cibles de responsables, et n'importe quoi qui très vite ne ressemble plus à vous devient un ennemi. À travers l'histoire, il y a eu la peste et les Juifs, le SIDA. Et les homosexuels, le chômage, la misère et, peu importe qui est votre voisin, ou votre peur imaginaire, les Noirs, les Mexicains, les personnes d'Afrique du Nord, les Russes, les Arméniens, les Chinois, les Anglais, les Tutsis, les Portugais, etc. N'importe qui, n'importe quelle frontière, n'importe quelle religion, apparence physique, n'importe quelle orientation sexuelle, groupe ethnique dans le monde, a aidé à fabriquer des ennemis quand il n'y a pas d'ennemis. Après, vous commencez à construire des murs, à supprimer des droits, empêcher l'accès à certains services, construire des campagnes de propagande et vous savez où ça va. Vous l'avez déjà vu. Vous l'avez vu à chaque élection. Vous les connaissez, vous savez qui elles sont, vous connaissez ces personnes qui sont leurs noms. Et vous savez que contre tout sens commun, même quand on l'étudie, ça marche. Et sans vouloir faire un point Godwin, vous n'êtes pas obligé d'arriver au final, irrémédiablement, sur un Adolf Hitler, un Benito Mussolini, un Kim Jong-un, un Bachar el-Assad ou n'importe lequel de ces créations aberrantes d'une contraction économique. On peut faire mieux cette fois-ci. Je vous dis pas que ça va être facile, mais on peut faire mieux. Au moins parce qu'on a appris. Les sondages montrent que souvent, les... à l'approche des élections, les craintes des électeurs sont relativement partagées. Le chômage, les migrations humaines, l'éducation, le terrorisme, la pauvreté, la santé, l'économie. La crise du coronavirus ces temps-ci, les crimes violents et bien plus. Devinez quoi Tous ces trucs-là sont plus ou moins concernés, affectés et concernés directement par ce que je viens de vous montrer aujourd'hui et ce que je vais encore vous montrer derrière. Est-ce que j'ai pas pris six minutes pour faire une petite liste rapide des catastrophes les plus dévastatrices qu'on a vues en simplement deux ans Est-ce que vous êtes sûr qu'il n'y a aucun lien entre les élections et les phénomènes récents à euh, un peu partout sur la planète. Et ça Et dites-moi, si vous pensez que ceci, c'est quelque chose, qu'est-ce que c'est à part un départ, un début euh... Vous vous rappelez de tout ça, je veux dire, juste une question. Combien de temps vous pensez que vous pouvez mettre avant de réaliser que c'est une petite. Fraction, un petit pourcentage de symptômes de la crise qu'on traverse. Seulement cette fois, il euh, n'y aura pas de guerre. Vous voyez, ce chien, on vous a rappelé de ce chien, euh, <laughs> il a été beaucoup utilisé et détourné à partir d'un vieux comics. Seulement cette fois, il n'y aura pas de guerre, en fait. Parce que les guerres, ça nécessite des ressources, de l'énergie, des matériaux, des gens, et que sans ça, vous n'allez pas à la guerre. Les guerres, ça ruine les pays y compris ceux qui ont gagné les guerres, soi-disant. Mais qu'est-ce qui se passe quand les pays sont déjà ruinés dès le départ Tout ce qu'on sait, c'est que la situation à laquelle on va faire face, elle est sans précédent. En dehors de construire des modèles, on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Rien ne se passera comme prévu. Faire face à une crise systémique globale comme celle-là est absolument sans précédent pour l'humanité. Gérer un monde en contraction a tous les inconvénients qu'on peut imaginer ou plutôt tous les inconvénients que vous ne préférez pas imaginer. Alors revenons en arrière et regardons la manière qu'on a eu d'utiliser nos ressources. Si je devais vous parler des ressources, je dirais qu'il y en aurait deux types. Il y a simplement celles qu'on peut exploiter, d'accord Il y a par exemple le soleil qui nous donne 12 000 fois plus d'énergie chaque année que le total de l'énergie consommée par l'humanité, ça c'est pas mal. Et euh, d'un autre côté... Il y a celles qui sont non renouvelables. Alors, celles qui sont renouvelables, on va dire celles qui peuvent se renouveler pendant une petite période donnée, c'est-à-dire le soleil, le vent, l'énergie des marées, la gravité, etc. On va dire aussi qu'on va englober celles qui peuvent se renouveler assez rapidement, c'est-à-dire boire de l'eau, euh, cultiver des céréales, la biomasse, faire brûler du bois qui repousse régulièrement, voilà, ou en quelques années, donc le, la poussée des forêts, l'accroissement, le, le développement des forêts, le développement animal, le fait qu'on a des animaux qui vivent et qui meurent, euh, l'humus dans les bois, voilà. Euh, en tout cas, ceux qu'on n'exploite pas ou qu'on ne consomme pas plus vite qu'ils se régénèrent. Et ensuite, il y a les autres, les sources qui ne peuvent pas se renouveler. Celles qui sont, pour se prononcer, dans une quantité quasi définitive ou définitive. Ça inclut des matériaux comme des éléments chimiques, à peu près tous les éléments chimiques, leurs combinaisons et quelques molécules à plus haut niveau comme le pétrole ou le gaz naturel. Le problème qu'on a, c'est que plus on se rapproche de zéro, plus elles deviennent difficiles à trouver. Donc on peut repousser le zéro et se donner l'illusion qu'il y en a encore un peu, c'est le cas pour le pétrole, mais à des coûts de plus en plus forts qu'on ne voit pas forcément. Quand vous le dites comme ça, vous imaginez qu'on avait ces quantités d'énergie renouvelables et non renouvelables, et que petit à petit, on a commencé à puiser dedans. Et même les énergies renouvelables, on puise dedans plus vite que la planète peut le faire. Alors, une fois que vous êtes conscient de ça, vous me dites, « Bah, c'est facile, il n'y a qu'à aller que sur les énergies renouvelables. » Et recommencer le monde comme avant, c'est terminé, merci, fin de la conférence. Malheureusement, non. C'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. D'abord... Parce que peu importe ce que vous faites, il faut construire des centrales. Ce qui coûte beaucoup, évidemment, d'argent et d'énergie et de matériaux. Vous pouvez seulement estimer quelle source d'alimentation de puissance développée, d'énergie est OK ou pas, en fonction de son cycle de vie complet. Ce qu'on appelle un cycle de vie complet, c'est depuis l'idée qu'on fabrique le truc, jusqu'à la fin, quand on n'a plus fini de s'en servir, qu'on l'a démonté et qu'on a géré les restes de ce qui restait quand on l'a démonté. Parce que construire une centrale, ça pollue énormément. Le faire, ça pollue. Pas seulement l'utiliser. Et sa fin de vie pollue énormément aussi, y compris une fois qu'elle est partie. Par exemple, une, pour vous donner des, des idées de, de type d'énergie sur ce graphe, une éolienne dépend de plein de facteurs au niveau de sa rentabilité. Le placement, la taille, la vitesse moyenne du vent, l'orientation du vent, l'humidité, euh, la chaleur, la forme, l'aérodynamique du rotor, la hauteur. Le poids de l'air, parce que l'air en fonction de son humidité euh, et plein d'autres facteurs est plus ou moins lourd, et il faut que le, le poids de l'air, des molécules qui sont dans l'air, viennent frapper les pales d'une éolienne pour les faire tourner. Et ça marche évidemment seulement quand il y a du vent. Ce qui ne veut dire pas tout le temps. C'est pourquoi on se les installe aujourd'hui offshore, dans la mer, parce que ça va être une bonne idée. Mais ça coûte énormément en câbles, en béton, en métal, en infrastructure. La moyenne d'entre elles va produire à peu près 100 kWh. À 4 MWh et ça fait à peu près 4500 MWh par an en moyenne, euh, ce qui correspond aux besoins de 1000 à 3000 personnes en fonction de plusieurs facteurs, à peu près l'équivalent de 400 tonnes de pétrole. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà ça. Pareil pour le photovoltaïque, les panneaux requièrent, un, requièrent une quantité phénoménale de matériaux, d'espace au sol, ça bouffe beaucoup d'espace. Il faut des hectares et des hectares pour faire des panneaux photovoltaïques au sol, ce qu'il faut, faut couper tous les arbres autour évidemment. Euh, même si on invente cette ancienne nouvelle manière d'utiliser l'espace qui est sous les panneaux solaires, notamment en plantant des choses et en mettant les animaux dessous, euh, mais ce n'est pas vraiment totalement au point. La puissance euh, de l'eau n'est jamais vraiment saturée, mais disons simplement pour résumer qu'on a construit à peu près tous les barrages intéressants à faire aujourd'hui. Pour vous donner une idée, l'Inde a 4000 barrages, la Chine en a 24000. Il y a toujours de la place, mais ça reste le barrage hydroélectrique l'énergie la plus dangereuse sur la planète, qui a tué à peu près 200 000 personnes depuis 1850 sur la planète. C'est assez dur à déterminer, les nombres sont plus ou moins précis, mais on en est à peu près par là. Donc au final, ce que vous voyez ici sur la gauche, c'est, on va dire, euh, utilisé avec quelques, quelques limites pour certaines d'entre elles. Et dans ces limites, on trouve que c'est relativement bas carbone. À droite, vous avez les énergies qui, elles, émettent beaucoup de carbone. On va dire les mauvaises trois énergies, le charbon étant, vous le voyez, loin, loin, loin devant. Inutile de dire, notre première priorité dans le monde, c'est d'arriver à supprimer l'utilisation du charbon, ce qui serait incroyable déjà. C'est possible, mais c'est extrêmement dur. Donc, comme vous voyez sur ce graphe, il n'y a aucune énergie qui est neutre en carbone. Il faut bien regarder ça haut. Oh une énergie, on dit généralement qu'elles sont bas carbone, c'est à dire en gros, ça suffit déjà pour sauver la planète essentiellement. Et parfois, maintenant, on essaye ce qu'on appelle du CCS, vous l'avez là ici, du Carbon Capture and Storage, c'est à dire en gros, on va on va pluguer sur des centrales des systèmes pour capter le carbone en sortie et le réemprisonner en disant est-ce qu'on sauverait pas un petit peu ça. Et évidemment, je vous passe un dernier problème structurel qui est de dire que c'est pas tout d'avoir une capacité à produire l'énergie, il faut pouvoir la gérer et la dispatcher, la répartir sur le territoire, à la demande. Et ça, c'est un autre sérieux problème auquel on fait face c'est que notre consommation d'énergie ne dépend pas de ce qu'on génère, mais de ce dont on a besoin. Quand vous êtes à la maison, s'il fait froid dehors, vous ne pas attendre qu'il y ait du vent ou du soleil pour réchauffer. Vous en avez besoin tout de suite. Pareil pour votre voiture, votre ordi ou n'importe quoi. C'est ce qui se passe quand vous avez chargé des véhicules électriques, euh, quand il y a une nuit où il fait très froid ou que tout le monde veut à peu près maintenir la température à l'intérieur à 20 degrés. Euh, C'est ce qu'on appelle euh, des énergies pilotables, dispatchable generation en anglais. On a besoin de piloter l'énergie produite et de savoir où on la conduit. Donc il faut adapter la production en fonction de la demande. Sans ça, ça veut dire des coupures électriques. Et ça, on ne peut pas le faire avec le soleil, avec le vent par exemple. Donc pour ça, alors que les barrages tournent la nuit par exemple, pour ça, il faut pouvoir stocker. Et si vous pensez que stocker ça se fait facilement, ça demande énormément de matériaux très chiants à trouver sur la planète et ça marche pas tellement bien pour l'instant le stockage énergétique à grande échelle. On n'y est pas encore. À nouveau, je ne vous parle pas ici non plus de comment on résout ces problèmes avec des pompes à chaleur, des sources adaptées, des énergies renouvelables correctement installées, de l'isolation neutre pour les bâtiments, des meilleures normes, etc. Euh, adapter le parc immobilier existant. J'ai pas le temps de passer en détail là-dessus, mais il y aura plein de solutions. Et si vous vous demandez pourquoi le photovoltaïque n'est pas encore aussi cool, c'est-à-dire qu'il consomme autant aujourd'hui, c'est pas mal. Si vous voyez sur ce graphique, en fait, en termes d'efficacité des cellules, on avance. On peut pas dire le contraire, on avance. Mais ce pas encore suffisant. C'est-à-dire que, pour l'instant, les challenges, c'est que les panneaux solaires doivent durer, doivent être changeables, maintenables, réparables, et que l'énergie qu'ils produisent doit être stockée. Parce que vous savez qu'il n'y a pas de soleil tout le temps sur la planète. Et il n'y a pas besoin de soleil pour ça, il y a besoin juste de lumière suffisamment forte. Donc, pas qu ait... Même avec des nuages, ça fonctionne, mais pas aussi bien. Parce que la puissance récupérée est en fonction de la puissance qui arrive sur les panneaux. On a besoin de faire des améliorations vraiment fortes sur les panneaux solaires pour commencer à arriver à quelque chose qu'on appelle satisfaisant. On les a fait, mais pas encore assez. Donc, il faut continuer d'encourager cette recherche-là. Si on arrive à continuer à monter, à monter, à monter sur cette efficacité, on va pouvoir arriver à faire quelque chose qui marchera plutôt bien. Pour l'instant, on peut dire simplement que c'est à peu près le même prix pour l'environnement que le nucléaire, les panneaux solaires. Donc, autant faire des panneaux solaires, parce qu'au moins ça dure plus longtemps, c'est plus facile à utiliser, et on s'embête moins avec. Alors, vous pourriez dire, bon, maintenant on sait tout. Donc, on devrait être en train de baisser notre consommation en énergie, mais super vite. Devinez quoi, c'est pas vraiment la direction qu'on prend. Ceci, ce graphe, représente le changement de croissance, je dis bien de croissance annuelle de consommation d'énergie. Vous le voyez, c'est toujours une croissance. À l'exception de quelques années, en 2009, quand ça a suivi une crise. Euh, dont on vous a, a dit souvent qu'elle venait euh, des banques d'affaires, etc., mais qui venait essentiellement d'un approvisionnement énergétique qui a considérablement décliné cette année-là, et pas seulement des subprimes euh, et des hypothèques de maisons aux États-Unis. Et il vous manque 2020, qui n'est pas encore calculé, mais on a à peu près de 4% de chute euh, en demande d'énergie. 5 à 10% dans le monde sur l'électricité, c'est en train d'être calculé. En 2020, essentiellement dû au fait d'une crise pandémique mondiale, celle du Covid-19, la demande en énergie a chuté dans le monde entier, sauf dans certains pays qui, eux, produisent toujours, comme la Chine, et elle est descendue d'à peu près 7,6% aux États-Unis, 7% en Union européenne. Parfois, on se pose la question et on se demande, euh... on peut se demander, se demander en fait ce que c'est le monde d'après. C'est quoi le monde d'après Et on se dit que cette conscience va nous atteindre collectivement. Euh, alors, oui, euh, on peut se poser cette question, mais sans aller trop loin dans la psychologie humaine, c'est plus ou moins évident qu'on attend que des décisions soient prises par des personnes de puissance et de pouvoir, les gouvernements, les présidents, les premiers ministres, les rois, les reines, les dirigeants industriels, etc. Mais on ne regarde jamais ce qu'on fait nous et ce qu'on fait au quotidien. Alors, je refuse toujours, pour des raisons de logique, d'aller sur l'évaluation individuelle du comportement des gens, y compris des personnes que j'aime beaucoup. J'essaie d'aller sur le, ma propre analyse, par exemple. Je m'autorise à me critiquer moi-même, ce qui est mieux. Parce que c'est toujours très difficile d'aller voir le mode de vie des gens et de critiquer ce que font les autres, à l'échelle d'individus. Mais je pourrais vous faire un collage Instagram qui n'est pas celui-là. C'est une image que je trouve sur le net, ça de tous les postes de cet été 2021, c'est-à-dire juste on sortit d'un confinement généralisé en France et dans d'autres pays en union européenne et toujours au milieu d'une crise de pandémie mondiale. J'ai à peu près 400 500 personnes qui postent régulièrement des choses qu'ils font sur deux ou trois réseaux sociaux. Après, il y en a 1000 de plus, mais les 1000 de plus postent quasiment rien. Sur ces 500-là, j'en ai vu au moins 5 prendre régulièrement l'avion pour aller en Corse, en Italie, au Japon, en Europe du Nord, en Afrique centrale, au nord de l'Afrique, aux Zanzibar, au Portugal, au Royaume-Uni, dans les Antilles françaises, et plus des deux tiers d'entre eux ont posté des photos à plus de 500 km de là où ils habitent. Plus d'un tiers d'entre eux a fait la promotion, par le biais de, du digital, de nouveaux appareils qu'ils ont achetés, de smartphones, de téléviseurs de voitures, de tout. J'en ai au moins trois qui ont posté de nouvelles voitures. Certains qui en ont acheté des anciennes, de seconde main, d'occasion. Quelques-uns ont acheté de nouvelles maisons pendant la pandémie, juste parce qu'ils avait plus l'ancienne. J'ai des gens qui, dans mes amis, ont pris un bus, ont construit, sont partis faire un road trip autour de l'Union Européenne, sur plusieurs milliers de kilomètres, avec du pétrole, évidemment. Il y en a qui ont posté chaque semaine presque 50 photos stories d'eux-mêmes avec absolument toujours les mêmes images, le même profil, la même chose. La plupart d'entre eux ne réalisent absolument pas à quel point l'intensité carbone annuelle de, ce, de leur comportement est énorme, ne serait-ce que pendant un mois. Et moi-même, parce qu'il n'est pas question de parler de mes amis je dis, je en disant je m'en fous, voilà, je les aime comme ils sont, j'ai essayé de regarder ce que je faisais moi-même et le nombre de posts de réseaux sociaux que je faisais. Combien je conduisais avec ma voiture, combien j'ai fait de kilomètres, où est-ce que j'ai été, ce que je me suis autorisé à faire, ce que j'ai acheté, etc. Le monde d'après, c'est pas seulement à propos de nos conceptions, mais c'est aussi à propos de nos constructions mentales et de comment on va se comporter derrière. Pour ça, il faut qu'on change nos mentalités. Rappelez-vous, un monde en énergie neutre, sans nouvelles technologies, ça veut dire que en dehors de ce qu'on peut faire avec nos jambes, il n'y a pas d'activité numérique. Pas de maison à plusieurs étages, pas d'essence, pas de gaz, pas de charbon, pas de barbecue, pas de supermarché, pas d'approvisionnement pour les hôpitaux, pas d'entrepôt. Beaucoup plus de temps passé à être des, des paysans, si c'est pas tout notre temps, aucun temps pour faire quoi que ce soit d'autre, pas de réseaux sociaux, pas d'emploi dans le service ou très peu, pas d'industrie lourde pas de déplacement, de mouvement, de voyage vers les pays voisins ou même à l'intérieur de votre pays. Si votre famille est à plus de 100 km de vous, vous aurez besoin de plusieurs jours, 2, 3, 4, 5 jours pour les rejoindre, etc. Alors avant que ça arrive, on va changer tout ce qu'on peut. Avant que ça arrive, on devra faire preuve d'un peu de présence d'esprit et d'arrêter de faire quelques petites choses. Il va falloir qu'on arrête numériquement de partager tout ce qu'on fait et de dire que ce qu'on achète, surtout quand c'est neuf, c'est cool. C'est exactement le contraire. Tout ce qu'on achète neuf est un échec pour la planète. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas. Parfois on est obligé, parfois on va quand même le faire. Mais en faire la promotion n'est absolument pas une bonne chose. Il faut qu'on arrête de partager nos voyages. C'est plus cool du tout de voyager. C'est même exactement le contraire. La plupart du bilan carbone d'une personne sur Terre aujourd'hui peut venir simplement d'un seul voyage en avion. Si vous le faites, faites-le silencieusement. On doit arrêter de considérer que la propriété individuelle, à outrance, les voitures, les motos, les maisons, les maisons secondaires, les appartements, c'est cool. C'est absolument pas cool, c'est exactement l'inverse. Ce qui est très dur à comprendre pour nous tous. On doit arrêter de fabriquer des objets qui sont inutiles. Ne me demandez pas lesquels, vous en avez plein sur le net, c'est absolument pas cool. On doit arrêter de produire des trucs, on va tous, toutes et tous, se recycler des objets pourris qu'on va essayer de fourguer, qui n'ont pas de valeur. On, va, on doit arrêter de penser que euh, porter des fringues un peu vieilles, c'est pas cool, ou c'est has-been. On doit arrêter de penser en sorte que ce qui est vieux est mauvais. C'est exactement l'opposé. Ce qui est vieux veut dire ce qui a survécu. Donc c'était plutôt rentable et intéressant. La qualité est intéressante. On doit arrêter de penser qu'avoir 1000 sociétés qui font la même chose et qui entrent en compétition, et qui du coup passent leur temps, leur énergie, et consomment l'énergie de la planète pour la compétition, c'est cool. C'est pas du succès, c'est un échec collectif. On doit par contre conserver tout ce qui fait que, intellectuellement, créativement, nos esprits humains fonctionnent. L'art, les activités à... de plein temps, euh, on va dire, euh, les activités artistiques, de temps libre, la culture, les loisirs, la paix. On a besoin de tout ça. Donc l'équilibre, il est fragile. On a besoin aussi de comprendre comment ces éléments-là peuvent devenir un problème pour la collectivité. Et comment on fait pour mieux s'y atta attacher, s'en préoccuper. Je pourrais aller vraiment faire des listes incroyables, mais cette conférence-là, je l'ai choisie justement pour s'adapter et se limiter à considérations digitales. C'est pourquoi c'est pas moi de vous dire, euh, ni à dire de qui que ce soit, ce qui est bon ou pas pour notre planète. C'est au contraire, l'inverse de venir vous dire, il faut qu'on le voit ensemble. C'est ça qui est important. Et il faut qu'on le voit ensemble de manière éclairée parce que c'est extrêmement difficile à mesurer. Et c'est bien au-delà des apparences. On a besoin de prendre les décisions ensemble. À chaque fois qu'on fait quelque chose dans nos vies, on pourrait participer à faire souffrir ou à tuer des gens dans le monde sans s'en rendre compte, passivement. Des animaux, des plantes, de la vie, nous-mêmes, sans que personne ne fasse jamais le lien. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir parano, c'est au contraire l'exact opposé. Il faut devenir conscient et éclairé. On a besoin de prendre du temps pour regarder autour de nous, dans notre vie de tous les jours, et se poser la question, par exemple, qu'est-ce que vous faites que les autres ne font pas Pourquoi On a besoin de prendre du temps pour réfléchir au bout de tout. On a besoin de métriques, c'est-à-dire de mesures d'appréciation pour dire est-ce qu'on prend des bonnes ou des mauvaises décisions dans la vie. On a besoin de comprendre notre impact sur le climat, les matériaux et la biosphère. Et je peux vous dire un truc, absolument rien n'est intuitif là-dedans. Rien. Et c'est là que ça devient super compliqué quand il commence à s'agir d'énergie et seulement d'énergie alors on fait tout ça avec un objectif en tête rester à 1,5 degré de variation au-dessus de la température à la fin du 19e siècle ce qui est déjà euh, impossible malheureusement euh, même si on ne l'a pas encore atteint euh, on va y arriver voilà on est déjà à un plus un euh, on va arriver à 1,5 degré quoi qu'il arrive on n'arrivera pas à s'arrêter avant mais on va essayer d'y arriver quand même quoi qu'il arrive comme dit captain america whatever it takes on va essayer de passer si possible, un cap où on s'arrête à plus de 2 degrés. On va s'arrêter là. Et c'est déjà une possibilité. Et on va se dire que, de manière raisonnable, on pourrait s'arrêter à plus de 0,5 degrés. En sachant que chaque centième de degré compte. On l'a vu tout à l'heure. On pourrait essayer d'arriver avec succès à une neutralité carbone en 2050. Et ensuite, on aurait un plan. C'est d'essayer d'enlever du CO2 de l'atmosphère dans la deuxième moitié du XXIe siècle. Et pour l'instant, on va pas vraiment dans cette direction comme on l'a vu. Si vous regardez d'où viennent les émissions des gaz à effet de serre sur la planète, voilà d'où elles viennent des pays qui fabriquent et des pays qui achètent, et parfois des pays qui font les deux. C'est le cas par exemple des États-Unis, de la Chine, mais pas que. Donc autant vous dire que c'est pas facile. Là où c'est gris, c'est qu'il n'y a pas forcément de données, d'accord et si vous vous demandez est ce que c'est que 5 degrés de variation, ben regardez ceci. Ceci, c'est une carte euh, reconstituée de, du monde il y a à peu près 12 000 ans, avec 5 degrés de moins qu'aujourd'hui. Voilà à quoi ça ressemblait il y a 5 degrés de moins qu'aujourd'hui. Autant vous dire que ce n'est pas tout à fait la même planète que celle qu'on a aujourd'hui. Les continents sont au même endroit, d'accord. Mais il y a beaucoup, beaucoup plus d'eau autour, donc il y a plus de terre autour des continents parce que toute l'eau s'est concentrée sous forme de calotte glaciaire de cryosphère sur les pôles. Voilà un peu à quoi ça ressemblait dans l'autre sens. Et si vous regardez aujourd'hui euh, où est-ce que pourrait précisément se répartir la température, il bah, y a des simulations trouvées sur le net qui peuvent vous donner tout ça. Les sources sont évidemment toutes en, en annexe à la fin de cette présentation. Mais voilà le problème, l'énergie, c'est pas le seul problème qu'on a. Et résoudre l'énergie va créer en cascade d'autres problèmes pendant qu'on essaiera de résoudre ces problèmes-là. Ça, c'est un truc dont vous vous souvenez probablement à l'école, le tableau des éléments de Mendeleev. Si vous vous souvenez de ça à partir du boulot, j'ai un peu plus de pression sur mes épaules maintenant. La plupart des gens oublient qu'en fait, ce qu'on appelle les métaux, c'est beaucoup plus que ce qu'on croit. C'est en vrai assez difficile de classifier les éléments atomiques parce que ces séparations, ces lignes-là, euh, elles sont pas strictes. De manière plus générale, on considère que les métaux ont des propriétés spécifiques, électriques notamment. Wikipédia dit qu'ils sont en fait des matériaux qui sont quand ils sont préparés suffisamment fraîchement, polis, fracturés, montrent une apparence lustrée, et conduisent l'électricité et la chaleur plutôt bien. C'est un peu compliqué d'expliquer comment on les classifie, mais en gros, ça a essentiellement trait aux électrons. Et là, il y a des physiciens un peu partout dans le monde qui cherchent où j'habite pour venir me tuer. Euh, la plupart d'entre eux viennent de ce qu'on appelle la nucléosynthèse du Big Bang, euh, pour les plus légers, et plus tard ce qu'on appelle la nucléosynthèse stellaire et la spaliation, le procédé à partir desquels les étoiles euh, vont créer tout ça à partir de l'hydrogène essentiellement, de l'hélium après, et du reste. Euh, puis de, on part de l'hydrogène, puis de le deutérium, le tritium, l'hélium, etc. Et on arrive à tout ce qu'on a dans ce tableau. Euh, c'est vraiment un résumé super grossier que je vous dis là. Les astrophysiciens, ils, la, ils sont en train d'envoyer la police chez moi directement. Euh, la plupart de ces trucs-là se trouvent dans l'univers actuel, mais pas tous. En fait, plus le noyau est gros, voyez, donc ça c'est la taille du noyau ici, le nombre atomique, plus il est gros. Euh, plus se dégrade facilement en d'autres éléments. Donc pour la première fois en 1937, on a synthétisé le numéro 43 ici, qu'on a appelé le technétium, qui vient du grec artificiel, qui n'existait pas ou qu'on ne trouvait pas sur la surface de la planète. Et ensuite on a commencé à en synthétiser 25 de plus, qui étaient supposés exister mais qu'on n'avait jamais mis en évidence. Donc pour l'instant, il y a peut-être une limite au nombre de protons et de neutrons qu'on peut faire rentrer dans un noyau, mais on n'est pas sûr de la connaître. Donc pour l'instant on va jusque-là. Euh... Ensuite, il y a les éléments qu'on appelle métalloïdes, ceux-là, sont proches des métaux, qui sont pas vraiment des métaux, mais pas complètement différents non plus. Et pour éviter un petit peu de, con de confusion pour la suite, les terres rares sont les lantanides, c'est-à-dire cette ligne-là, ici, qui est dans les deux lignes du bas. Euh plus l'ytrium et le scandium qui sont là. C'est ce qu'on appelle les terres rares. C'est un ensemble d'éléments qu'on appelle les terres rares. Alors, ils sont généralement appelés terres rares. Euh, il y en a 17 d'entre eux qui sont quasiment indissociables les, un, enfin, un, indistinguables les uns des autres. Et contrairement à ce qu'on peut penser, ça n'a rien à voir avec leur rareté. Ils sont assez communs dans la croûte de la Terre et on les trouve assez facilement. N'oubliez pas, ça c'est bien les terres rares. D'accord Le mot terre rare, pas matériaux rares. Parce que justement, à part cette petite blague atomique que les physiciens nous ont balancée, on a un problème. Comme vous l'imaginez, on ne fabrique pas ces éléments tous les jours. Même jamais pour la plupart. On pourrait, mais ça demande énormément d'énergie. Imaginez, rappelez-vous, c'est ce que font les étoiles toute la journée. Euh, et pour vous donner ce que sont la taille de fond les étoiles, notre Soleil, je vous l'ai dit tout à l'heure, fait 109 fois la taille de la Terre, et le plus gros, la plus grosse étoile qu'on connaisse, c'est Uyghur Cutie, qui fait 1700 fois plus que le Soleil. Autant vous dire qu'on est une petite, toute petite graine de poussière à côté avec la planète Terre. Hein. Bon, donc ce qu'on a sur la Terre, euh, à l'exception de quelques toutes petites, petites microscopiques quantités qu'on a besoin de produire, c'est ce qui nous reste pour aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de notre civilisation. Et ceci, c'est une table de ce qu'on va maintenant appeler la rareté des matériaux. La rareté veut dire est-ce qu'on les trouve facilement ou pas À nouveau, certains sont trouvables sur la planète. La question c'est à quelle profondeur, quelle largeur doivent faire les mines pour les trouver, pour en trouver des quantités suffisantes Et qu'est-ce qu'on appelle une quantité suffisante Et si vous vous demandez ce que c'est que la rareté, réfléchissez deux minutes. Quelle est la définition d'un métal Rare et qui a de la valeur. En général, on pense à l'or. Alors réfléchissez deux minutes. L'oxygène, c'est 46% de la croûte terrestre. Le silicium, 28%. L'aluminium, 8%. Le carbone, 0,02%. L'azote, 0,0019. L'or, c'est 0,00004%. Et le plutonium, c'est 0,1403% de la planète. Maintenant, je pense que vous savez ce que ça veut dire, rareté. Et en plus de ça, comme si c'était facile, ils ne sont pas distribués de manière équitable et égale sur la planète, entre la surface et le sol des océans, et certains sont dans l'atmosphère en plus. Alors, vient un nouveau problème. À travers cette liste complète, on utilise quasiment tous les éléments. Il y a 60 ans, on utilisait à peu près 40 métaux différents, aujourd'hui on utilise 80. Ça, c'est l'abondance des métaux sur la planète Terre. Comme vous le voyez, plus c'est coloré foncé, comme ça, plus on les trouve facilement. Quand c'est pas coloré, ou que c'est noir, c'est qu'on les trouve pas du tout. Ce qui ne nous empêche pas de les utiliser parfois. Donc devinez, devinez ce que c'est le résultat de tout ça. Qu'est-ce qui se passe ben, Vous avez compris, en fait, on est en train de manquer de certains de ces matériaux dans les années à venir. Pas dans des milliers d'années. Pour certains, l'extraction est déjà en déclin depuis longtemps. Et on s'attend à ce que certains d'entre eux manquent d'ici 10 à 20 ans déjà. Et pourtant, non seulement ils manquent, mais en plus, on va les miner et les extraire du sol de plus en plus et la demande s'accroît. C'est pourquoi la plupart des pays ont commencé à construire ce qu'ils appellent des euh, éléments stratégiques, des conseils éléments stratégiques, des métaux stratégiques. Pourquoi parce qu'on s'attend à ce qu'on ait 2,5 fois plus de besoin de tous ces matériaux d'ici 2060. Alors, vous allez me demander, mais à quelle vitesse est-ce qu'on brûle ces ressources La réponse est la suivante. En moyenne, on a tracé tout ce qu'on a pu utiliser comme matériaux depuis le début de l'humanité et ce qu'on aurait probablement comme quantité dans le monde qui aurait été extraite. On en a bouffé à peu près autant sur les 70 000 dernières années jusqu'à aujourd'hui en 2021, 2020 pour être exact, ce chiffre devient 2020, qu'on va en manger dans les 30 prochaines années. Et ceci, c'est ce qu'on appelle, pour certains, la croissance structurelle de long terme. Vous voyez à quel point c'est un mensonge et un échec complet. Il n'y a pas de croissance structurelle de long terme. On a une fin, et la fin, elle est juste devant nous. On a les pieds devant. Mais vous savez quoi C'est pas seulement les atomes, le problème c'est que on peut les considérer comme molécules aussi, des assemblements des assembl plus complexes en fait d'atomes, de de, enfin des molécules. Et devinez quoi bah, Même ceux qui nous posent problème, comme par exemple le charbon, qui est le numéro 1 responsable des gaz à effet de serre, ne sont pas infinis. Il nous reste à peu près 400 ans, 400 années, 4 siècles de charbon avec l'extraction qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est à quoi ressemble une mine de charbon à Foshun, au Liaoning, en Chine et ça, ça vient de Datong, au Shanxi, en Chine également. Et la deuxième image ici vient de Hefei, dans la province d'Anhui, toujours en Chine. Voilà à quoi ressemble l'extraction du charbon aujourd'hui. Et ces femmes que vous voyez là sont en train de récupérer des restants de charbon sur un site de décharge à Djaria, en Inde, près du mine de charbon. Je pourrais vous montrer n'importe quelle mine elles ressemblent toutes plus ou moins à ça. Le graphite, l'or, l'argent l'uranium, etc. Elles ont toutes des conséquences catastrophiques pour l'environnement. Comme vous voyez, il n'y a plus rien qui pousse autour. L'eau, l'air, les gens meurent par milliers autour. Les gens quittent leurs maisons, les plantes arrêtent de pousser, des zones entières sont dévastées et vidées de toute forme de vie. Je pourrais vous le dire à peu près la même chose pour le gaz naturel. On se dirige vers la fin. Il nous resterait à peu près 150 ans avant la fin du gaz naturel. Et vous vous souvenez du pétrole bah, ce truc-là euh, qui sert à bouger les choses et tout, bah, devinez quoi, euh, vos voyages vers les pays étrangers, euh, vers la famille, tout ça, ils vont très vite prendre fin et ils vont s'arrêter d'ici peu. Et les gens qui aujourd'hui 20-30 ans, sans problème, n'auront pas le loisir de se déplacer avec du pétrole jusqu'à la fin de leur vie. Pourquoi Parce que le pétrole, même si vous avez entendu ça depuis votre prime jeunesse, on a déjà passé l'exploitation, le pic d'exploitation de pétrole conventionnel. Et en 2027, on devrait arriver au pic d'exploitation de tous les types de pétrole. N'oubliez pas, c'est pas le problème du pétrole. C'est nous qui avons choisi d'aller voyager beaucoup. Quand vous habitez, par exemple, à 500 km de votre famille, vous allez les voir un week-end sur deux ou un fois enfin, par mois, malheureusement, c'est pas normal. C'est pas un droit que vous avez qui est inné. C'est quelque chose que l'ensemble de l'humanité a fabriqué pour vous permettre de le faire. Personne, absolument personne ne faisait ça il y a trois siècles. Personne. On, on voyageait même pas un week-end, une semaine ou un mois. On voyageait rien. Il fallait des mois entiers pour traverser le pays en utilisant toutes ses ressources et tout son argent. Alors vous allez me dire, mais si on manque des trois sources d'énergie principales, charbon, pétrole, gaz naturel, bah allons-y, on va fabriquer des centrales nucléaires, non En avril 2020, il y avait dans le monde 440 réacteurs nucléaires euh, opérationnels dans le monde, qui produisent une capacité combinée au total d'à peu près 390 gigawatts. En plus, on en a 55 en construction et 109, 109 qui sont planifiés, avec une capacité d'à peu près respectivement 63 gigawatts et 118 gigawatts. Euh, et 329 réacteurs de plus sont proposés dans le monde. Un réacteur nucléaire produit en moyenne 1 gigawatt d'énergie. Le monde consomme 23,4 TWh chaque année, ce qui fait qu'on aurait besoin d'un petit peu plus de 20 000 réacteurs nucléaires pour avoir 100% de notre énergie, avec la demande et la croissance actuelle. Mais il y a d'autres facteurs à considérer. Un réacteur nucléaire va demander à peu près 20 km, 20,5 km de terrain pour euh, placer la centrale elle-même, sa zone d'exclusion, euh, sa centrale d'enrichissement, le traitement des minéraux et. Euh, L'infrastructure qui la supporte. Deuxièmement, les réacteurs nucléaires doivent être euh, localisés près d'un un corps de refroidissant euh, intense, fort et présent, de l'eau en général, mais suffisamment loin des populations de densité euh, forte et des zones de désastre, de catastrophes naturelles. On a vu pourquoi. Trouver 15 000 lieux sur Terre qui pourraient accueillir. Euh, ce genre de choses, c'est un challenge absolument incroyable, pour pas dire intenable. Chaque centrale nucléaire qui est actuellement en opération a besoin d'être euh, décommissionnée, donc euh, détruite, démantelée, euh, après 40 à 60 années d'exploitation. Essentiellement pour un phénomène euh, de ce qu'on appelle le neutral embitterment, c'est-à-dire en gros, les. les, les, les les éléments du cœur du réacteur au-dessus s'abîment et il y a des fissures qui se développent dans les métaux à cause de la radiation. Si ces, ces, ces centrales nucléaires doivent être remplacées tous les 50 ans en moyenne, alors avec 20 000 centrales nucléaires, ça veut dire qu'il faut faire une centrale nucléaire qui doit être construite et une autre qui doit être supprimée, terminée, fermée tous les jours dans le monde. Ça fait du boulot. En ce moment, et puis il faudra fabriquer ça avec du, du béton. Ça demande beaucoup de béton et de métal et d'acier, qui elle-même demande beaucoup, beaucoup de carbone. Peu, même si vous faites avec de l'énergie nucléaire, hein, il faut fabriquer du béton et du métal ça demande du carbone de faire de l'acier. Actuellement, ça prend 6 à 12 années pour faire une centrale nucléaire et 20 ans pour la fermer. Ce qui fait que ce cycle de remplacement est absolument irréaliste. Et je ne vais même pas vous parler du traitement des déchets nucléaires, euh, qui sont classés en trois genres en général, c'est-à-dire que l'uranium appauvri jusqu'aux gants des personnes qui ont travaillé dedans, les roues, les matériaux, les chariots, etc., euh, qui sont toujours supprimés par précaution, même s'ils ne sont pas radioactifs. Bien, en fait, ça fait que le, les déchets nucléaires sont assez minimaux en fait au final. Depuis le début que ça existe, depuis le début, hein, sur l'ensemble de la planète que tout existe, on a généré à peu près euh, un total, total accumulé de tous les déchets d'un hectomètre cubique, c'est-à-dire 100 mètres par 100 mètres par 100 mètres. Et seulement 3% de ces déchets retiennent 96% de la radioactivité. C'est-à-dire qu'on n'a quasiment rien fait. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a une rentabilité par matière qui est un million de fois plus rentable, deux millions de fois plus rentable que celle des molécules. Et euh, il y a d'autres problèmes encore. C'est que les matériaux qu'on utilise pour faire les centrales nucléaires, eux aussi, sont concernés par le tableau des slides d'avant où je vous ai montré que des matériaux, on en manquait. Il y a des matériaux très précis pour absorber, faire rebondir les neutrons et les manipuler. Et ces matériaux sont rares et on ne les trouve pas forcément où on veut. Et même si on voulait, ce n'est pas le problème. Le même problème, aussi fou que ça soit, pour casser les atomes, pour générer de l'énergie, vous avez besoin d'atomes fissibles. Et vous avez besoin de créer des réactions en chaîne avec ces atomes fissibles. Avec un petit peu d'énergie en entrée, vous avez beaucoup d'énergie en sortie. Et pour ça il vous faut des atomes qui correspondent à ces critères et il n'y en a quasiment pas. En fait, le seul qu'on trouve sur la Terre, c'est l'uranium 235. Je vous l'ai dit tout à l'heure. 92 protons, 143 neutrons. Cet isotope, donc cette version de l'uranium, compte pour seulement un total de 0,72%, 60... moins de 1% de l'uranium total sur la planète, qui est souvent essentiellement de l'uranium 238 qui ne marche pas pour ça. En gros, il nous reste sur la planète à peu près 80 années d'uranium 235. En suivant... L'utilisation actuelle de l'énergie à travers les centrales nucléaires. Si en plus on avait magiquement, comme ça, un coup de baguette magique, 100% de la puissance, ça veut dire, imaginez, c'est tout, c'est les véhicules, les avions, tout, etc., qui marchaient sur du nucléaire, on aurait vidé ces ressources en moins de 5 ans. Comme vous pouvez deviner, l'uranium vient du début de la planète Terre et n'est plus généré sur la planète Terre aujourd'hui. Alors même si c'est une source de carbone basse, de bas carbone, c'est strictement non renouvelable et c'est perdu pour toujours quand c'est utilisé. On ne peut donc pas non plus se baser sur le nucléaire. Je pourrais vous dire combien de temps on a de chacun des matériaux, mais vous devez vous souvenir d'une chose. C'est extrêmement rare à estimer, ça dépend de la méthodologie et des dernières informations dont on dispose. Personne ne publie les mêmes résultats, il faut prendre une méta-étude, une, une tendance globale, un ordre de grandeur. Vous le prenez comme vous voulez, de toute manière, on est à court. Et on va être à court super vite. Et la quantité qui reste n'est pas seulement le problème principal, c'est pas qu'il n'y en ait plus, c'est qu'en plus ça va créer des risques et des tensions politiques, économiques, sociales, avec des régions lesquelles on récupère ces matériaux. Si vous regardez ici, vous avez les matériaux dits stratégiques et pertinents, vous voyez que la plupart d'entre eux sont des nombres à deux chiffres pour le nombre d'années qui restent. La couronne extérieure, c'est celle qui est optimiste. Celle du milieu, c'est celle en consommant aussi vite que les États-Unis. Pour référence. Ça veut dire qu'il nous reste à peu près quoi 30 ans d'antimoine qui est utilisé pour la médecine. Il nous reste à peu près la même chose pour euh, l'argent, pour les pots catalytiques. Euh, 40 pour faire de... pour le... l'aluminium, le, 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 euh, pour, pardon, pour l'étain, euh, qui sert pour les... Pour les soudures électriques, électroniques dans les circuits. 13 pour l'indium. L'indium, c'est ce que vous avez sur vos écrans de smartphone, les TV que vous arrachez tous les ans, qu'on jette, etc. 40 pour le plomb, qui est utilisé pour les batteries. Peut-être pas dans les piles chez vous, mais pour plein de batteries industrielles. Euh, J'avais un autre document. Euh plus ancien que celui-là mais qui est estimé à 60 d'uranium, euh, c'était le cas de celui-là par exemple dessus qui estime à 60 années d'uranium donc il est encore plus pessimiste que l'autre euh, mais on a changé un petit peu la manière d'extraire l'uranium donc on a trouvé quelques années de plus dessus mais voilà. 45 pour l'or, n'oubliez pas que l'or est très utilisé pour le dentaire donc va falloir soigner les dents des gens, on les aura pas non plus, enfin, voilà. Je pourrais vous montrer plein d'études différentes là aussi. Euh, juste, je vous dis, rappelez-vous que c'est très difficile à estimer. Euh, plus vous lisez d'études, plus vous aurez une idée générale de ce qu'il y a à faire dessus. Ne prenez pas ces graphiques pour acquis directement, tels qu'ils ressemblent. Ne notez pas les valeurs. Euh, prenez des réserves larges, en fait. On a trouvé, par exemple, depuis quelques années, des manières d'étendre les réserves de pétrole qu'on a dans le monde, considérablement. Euh, euh, enfin, à considérer comme acqui acquirables, en fait, euh, exploitables pour l'humanité, mais euh, à un coût très élevé aussi. Donc, on pourrait faire la même chose pour les matériaux et dire on va trouver une nouvelle manière d'utiliser. Et comme vous devinez, on rentre dans une ère qu'on appelait la diplomatie, la diplomatique euh, minérale, la diplomatie minérale, qui fait qu'on va être euh, volontairement, ou alors une volonté d'être indépendant, mais que voilà, ça va être compliqué. Certains pays comme la France, par exemple, ont fermé leurs mines il y a bien longtemps, n'ont plus de mines, et certains pays ont des ressources euh, extrêmement valorisées. De, de, dans, le, dans, le, dans le sol, mais les gens, les populations locales ne sont pas prêtes à ouvrir ou réouvrir ces mines pour aller les exploiter parce qu'elles savent très bien ce que ça veut dire derrière. Alors au final, ça va engendrer des tensions, des incompréhensions de la part des gens. En d'autres termes, vous pouvez pas aujourd'hui prendre une voiture et filmer avec votre smartphone une, une émeute contre les réouvertures des mines euh, et être contre. La réverture de ces mines. Vous ne pouvez pas aujourd'hui dire je veux un nouveau smartphone et dire faut pas prendre, des... faut pas créer des mines chez nous, il faut pas que des gens aillent mourir dans les mines. C'est un comportement qui est absolument paradoxal. Vous ne pouvez pas non plus vous attendre à ce que certains pays le fassent pour vous et meurent à votre place, comme c'est le cas aujourd'hui, notamment pour la Chine, l'Afrique du Sud, etc. Au bout d'un moment, ces pays vont dire stop, et donc il faudra trouver les matériaux ailleurs. C'est exactement ce qu'on appelle la diplomatie minérale, un terme qui émerge depuis quelques années. Il va falloir penser en termes d'économie circulaire, autant que faire se peut. C'est-à-dire qu'il va falloir plus que probablement écrire des lois à nouveau et donner de la valeur aux produits secondaires, ceux qu'on peut recycler et réutiliser, au lieu des produits primaires, ceux qu'on peut extraire dans le sol. Sur l'Union européenne, il y a des commissions, je l'ai dit, comme tous les pays, comme tous les groupes de pays en ont. Et. Euh, si vous voyez ici, vous avez la liste des, des matériaux critiques pour l'Union Européenne, euh, comme c'était en 2020. Euh, sur les 83 qui étaient dedans, il y a 66 candidats qui ont été revenus dans les matériaux qui ont été euh, regardés et analysés. Les 30 suivants, qui sont là, ici, en rouge, ont été identifiés comme critiques dans cette étude, dans le coin, enfin la partie en haut à droite. Ce qui montre euh, ici le développement économique euh, d'un côté et l'importance de trouver des. Euh, le risque de trouver de, de manquer d'approvisionnement. De, de, Depuis le dernier rapport en 2017, ils en ont enlevé un, l'hélium qui est parti ici, vous le voyez, et ils en ont rajouté trois à la place. Autrement dit, c'est pas bon du tout, du tout, du tout, et c'est très mal parti. Si vous voulez juste un peu d'explication, les H R E, -E L R -E, e ici, ça veut dire les heavy light rare earth elements, c'est-à-dire les terres rares lourdes et les terres rares légères. Vous vous rappelez ce qu'on a dit tout à l'heure et les PGM, c'est les Platinum Group Metal, le groupe des métaux platine qui contient un ensemble de métaux qui se situe, je plus où il est, quelque part euh, au milieu de là. Enfin voilà. Ok Alors pourquoi on les utilise, ces métaux Bah, si vous voulez un aperçu des technologies clés auxquelles on croit en ce moment, qui peuvent nous apporter un gain pour l'humanité, euh, il y a ces technologies-là. Donc en gros, vous voyez qu'elles sont plus ou moins liées à l'activité du digital, euh, du numérique, plus ou moins aujourd'hui quoi. Donc vous avez par exemple 3DP, c'est impression 3D, euh, ICT, c'est technologie de l'information et de la communication, c'est les NTC en français, euh, PV, c'est photovoltaïque ici. Donc vous voyez, il y a un autre problème. Euh, même si on voulait être euh, entièrement photovoltaïque et énergie euh, des vents, énergie éolienne, on ne pourrait pas. Le silicium, le néodyme, on en a besoin d'une tonne pour faire un, une éolienne offshore, euh, par exemple. On n'en aura pas assez. On aura besoin de cuivre pour construire le réseau électrique. On a besoin de lithium, de cobalt, de nickel pour les batteries, d'aluminium, de magnésium pour les, 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 les pales, etc. pour la carcasse extérieure. On n'en aura pas assez. On a à peine les matériaux pour faire une fraction de ce qu'on veut faire. Donc dites-vous un truc, le 19e siècle était à propos du charbon. Le 20e siècle, c'était le siècle du pétrole. Le 21e siècle va être le siècle des métaux. Mais voilà un autre problème. Vous allez me dire, on pourrait recycler. Là aussi, mauvaise nouvelle, faut penser à nouveau. Le recyclage ne va pas être un game changer, ne va pas changer la donne pour tout le monde. Euh, le recyclage veut dire que vous récupérez une partie de ce qui avait été initialement utilisé. Ce qui veut dire, premièrement, que vous de toute façon, vous êtes limité à 100% des matériaux d'origine. Si vous recyclez tout, ce qui est fabuleux, chapeau, en théorie, vous n'arriverez jamais... À plus que 100%. Et de toute façon, il n'y a rien qu'on peut recycler, qu'on puisse recycler à 100%. J'ai rien, absolument rien. C'est toujours plus ou moins perdu. Mais malheureusement, la chimie, c'est pas aussi simple. On peut pas tout recycler et on ne sait pas tout recycler. N'oubliez pas que certains métaux sont utilisés généralement ce qu'on appelle des alliages, c'est-à-dire des, des assemblages de métaux, et qui sont beaucoup plus faciles à assembler qu'à désassembler et à dissocier l'un de l'autre. Et dites-vous en plus que de toute façon, le recyclage n'est pas neutre. C'est cool! Mais ça génère aussi beaucoup de déchets. Et il faut aussi traiter ces déchets et recycler le recyclage du traitement du recyclage. Et c'est aussi très cher. Donc ce diagramme là vous montre à peu près ce qu'il y a aujourd'hui qui est recyclé essentiellement en Europe, par exemple. On doit développer ce secteur, évidemment on doit développer le recyclage. On doit innover, parce que on sait qu'on ne pourra pas tout recycler et qu'on ne pourra pas tout faire, mais qu'on sait aussi qu'on ne sait pas encore tout faire et qu'on progresse. Et à l'intérieur de ce qu'on sait, on doit pouvoir faire des efforts. Est-ce que vous avez déjà vu ces images? Je ne sais pas si vous avez déjà vu. À votre avis, c'est quoi? Je vous laisse un moment, parce que ça demande réflexion. Est-ce que vous avez une idée de ce que c'est que ces deux, ces deux images de la planète Terre à gauche et à droite Qui sont centrées sur l'Europe, on les trouve centrées sur les US ou ce qu'on veut. Celle qui est à gauche, c'est la quantité totale d'eau qui est sur la Terre, comparée à la Terre solide. J'ai bien dit d'eau, y compris tous les océans. Si je vous montrais l'eau qui est potable, vous imaginez qu'il y a une même petite boule sur cette boule d'eau qui représente la même proportion par rapport à la Terre derrière. Vous pourrez à peine la voir. Celle ce qui est sur la droite, c'est la quantité totale d'air qui est autour de la planète. Ça ne fait pas beaucoup non plus. Hein. Donc comme avant, comme je l'ai dit pour l'eau, une petite partie de cet air est respirable pour nous. Le reste n'est pas dans des points de proportion. Ou toxiques, on l'a vu tout à l'heure. Ça serait une petite sphère à côté. Dites-vous qu'aujourd'hui, il y a une personne sur neuf dans le monde qui utilise de l'eau qui est euh, jamais traitée, qui vient de ressources, de sources d'approvisionnement d'eau, qui sont absolument pas fiables. C'est-à-dire qu'en gros, elles sont extrêmement risquées. Il y a 2,4 milliards de personnes qui vivent dans des endroits dans lesquels il n'y a aucune forme de traitement d'hygiène de l'eau ce qui est une des formes les plus significatives au monde de pollution de l'eau. Il y a 300 000 enfants qui meurent chaque année à cause de la pollution de l'eau. Il y a 1,8 milliard de personnes qui boivent de l'eau qui est contaminée par les sels des autres personnes autour, ce qui conduit à 502 000 morts de diarrhée chaque année. Il y a 90 des égouts dans les pays en voie de développement qui sont directement déchargés, vidés dans les cours d'eau c'est-à-dire 80% dans le monde. Ça fait qu'il y a 2 millions euh, de tonnes de rejets dans les égouts chaque jour qui sont relâchés dans euh, différents corps d'eau, différents cours d'eau, différentes structures d'eau qui sont artificielles ou naturelles dans le monde. L'industrie décharge à peu près 300 à 400 millions de tonnes chaque année de saloperie, on va dire, de toutes formes, dans les cours d'eau, au total. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas que la pollution ponctuelle, il y a la pollution non ponctuelle, comme par exemple l'agriculture et les aires urbaines, celles dans lesquelles il y a de la vie dense, la ville, qui, 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 qui augmente énormément, de manière violente, hein, les, le, le total de la pollution qu'on trouve, et la pollution industrielle, en plus des sources de pollution ponctuelles. Une réduction d'un tiers de cette biodiversité euh, qu'on a perdue dans le monde est estimée uniquement à partir de l'eau et de la dégradation des écosystèmes qui étaient dépendants des ressources d'eau et euh, des écosystèmes aquatiques essentiellement. Donc voilà, dites-vous qu'aujourd'hui il y a déjà à peu près 700 zones mortes dans le monde dans lesquelles les animaux marins ne peuvent plus survivre. Ça représente la taille du Royaume-Uni sur la surface des océans. Dans d'autres mots, en fait, si vous voulez de manière différente, euh, des études très sérieuses des Nations Unies ont montré que euh, d'ici quelques années, la probable moitié du monde n'aura aucun accès à de l'eau potable. Plus d'un tiers. C'est sûr et certain. Plus d'un tiers, et probablement la moitié. À peu près 52% des gens, de la population du monde, ont vu dans des régions dans lesquelles il y aura moins d'eau aujourd'hui, euh, moins d'eau en 2050, pardon, qu'aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y aura à peu près 24 à 700 000 millions de personnes qui vont se déplacer juste pour des raisons d'eau. Notamment, par exemple, au Cachemire, à la frontière de l'Inde et de la Chine. Devinez ce qui se passe quand les gens bougent en masse parce qu'ils ont soif et parce qu'ils ne peuvent plus boire. Et parce que les bétails, la vie à côté de nous, ne peuvent plus boire non plus. Donc, en gros, euh, la sphère à gauche, ici là, euh, elle était liée... Euh, à Des phénomènes naturels au début, l'eau, euh, mais aujourd'hui elle vient essentiellement être perturbée par le fait de drainer des sels du fond des océans euh, vers le haut des océans, de faire des, des, des eaux qui vont être altérées, qui vont être plus salées, etc. Et devinez quoi, euh, le traitement des eaux usées contribue aussi de 3 à 7% aux émissions de gaz à effet de serre dans le monde, c'est-à-dire que même traiter la pollution des eaux pollue. Et je ne vais même pas vous parler des 5 gires de plastique qui flottent euh, sur les 30 premiers mètres des océans à peu près, qui sont essentiellement emprisonnés dans 5 vortex, 7 si on compte différemment. Euh, ce sont des eaux avec une très petite densité de plastique. Euh, C'est à peu près 18 000 pièces de plastique par kilomètre carré. Donc euh, ne regardez pas les photos, on vous montre des tas d'immondices dégueulasses, ça s'était pris près des, près des habitations humaines. Au milieu de l'océan, ça se voit pas. Il faut plonger dedans pour le voir. Et 90% de ce plastique est non biodégradable. Je ne vais pas vous parler non plus des dizaines de composants chimiques qui sont générés par ce plastique et qui viennent polluer, qui sont vraiment dangereux. On utilise à peu près 90 millions de tonnes de plastique chaque année et 10% arrivent dans les océans. À peu près 30% restent à la surface de la planète et le reste euh, la surface de, de l'eau et le reste coule. Je veux dire, à votre avis tout ce qui tombe, qui est jeté ou qui, sans que personne le voit, s'envole dans la rue et qui atterrit par terre, qui tombe de vos poches, les bouts de plastique et de tissu de vos pantalons, l'usure de vos pneus, de vos chaussures, de tout, ce que vous jetez par les fenêtres, ce qui tombe, les petits bouts de plastique, de paquets de clopes, de ce que vous voulez dans la rue, à votre avis, ça va où Sincèrement, vous pensez vraiment que quelqu'un le ramasse Au bout d'un moment, c'est trop petit, ça se voit pas. Le seul truc qu'il emporte, c'est les courants qui drainent tout ce qui est à la surface et qui l'amènent vers les océans. Toutes les petites particules de plastique arrivent là. A votre avis, tout ce qui vient de la coque de votre smartphone et qui s'use, toutes les pièces, les petits bouts de métal, de plastoc, de, de tuyaux, de durite, de votre moto, de votre vélo, euh, de votre voiture, de votre tracteur, vos, vos différentes sources d'usure de vous, de ce qui y avait autour de vous, la peinture qui part de vos lunettes, qui tombe par terre, tous ces petits trucs, à votre avis, ça va où ça atterrit dans les océans, toujours. Pensez vraiment que quelqu'un va ramasser tout ça et sait le ramasser et peut le ramasser Pensez qu'il suffit de se baisser pour ramasser Pensez que vraiment les gens qui nettoient les rues, quand il y en a, c'est pas partout dans le monde, nettoient vraiment tout malgré leurs efforts incroyables pour tout nettoyer Il y a 54% des espèces marines sur la liste des espèces menacées qui ont été observées, prises dans du plastique ou avec du plastique qu'elles auraient ingéré. Les produits chimiques qui sont utilisés dans le plastique sont trouvés dans les poissons, les mollusques, les mammifères marins et dans toutes les formes de vie marine à peu près, qui au final sont consommés par nous. En gros, on les tue, on tue ce qui, ce qui les bouffe, qui les tue aussi, et à la fin, on se tue nous-mêmes en bouffant ce qui les tue. Et la densité de plastique a été multipliée par 100 uniquement ces 4 dernières années, jusqu'à 2020. Alors, pendant que vous essayez de trouver la réponse, je peux vous dire euh, exactement où ça finit, si vous cherchez. Regardez la carte, ça atterrit ici, essentiellement. Alors, ok, mais euh, tout n'est pas à propos de l'eau. On peut regarder euh, en coupant un peu l'espèce de gros melon gigantesque sur lequel on habite. Ça, c'est la Terre à nouveau. Mais cette fois, on va parler de ce qu'il y a à l'intérieur de la Terre. Ou plutôt, juste à la surface de la Terre, sous nos pieds. La Terre, vous le savez, c'est constitué de trois couches la croûte, le manteau et le cœur. La moitié de son rayon est constituée du cœur l'autre moitié du manteau et de la croûte. La croûte, ça représente à peu près 1,4% de l'épaisseur de la Terre c'est à peu près 35 km. C'est fait de deux types de croûtes continentale et océanique. La croûte continentale, ce qu'on appelle felsique. En, géo en géologie, felsique, ça veut dire que c'est une, une roche volcanique essentiellement euh, qui est euh, riche en éléments comme le feldspalt et les quartz. En contraste avec les roches mafiques, qui sont des roches qui sont plutôt riches en magnésium et en fer. Felsique, ça veut dire que ce sont des minéraux silicatés, du magma et des rochers qui sont enrichis euh, avec d'autres éléments plus légers comme le silicium, l'oxygène, l'aluminium, le sodium, le potassium. Tous ces minéraux silicatés sont la base de la vie. C'est grâce à ça que ça s'est formé et aussi que ça continue d'exister aujourd'hui. Ensuite, quand vous avez ces espèces de polyèdres qui enferment donc le silicium, etc., dans le sol, au milieu des atomes d'oxygène, vous avez les hydrométéores. Donc, vous savez ce qui tombe sur la Terre, de l'eau, essentiellement de la pluie. La pluie, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Bon, bravo, vous savez, c'était de l'eau. Euh, c'est assez dur, on l'a dit, c'est même très dur de casser les liens. Dans les molécules d'hydrogène oxygène Pour info, il faut, monter, il faut chauffer de l'eau à 2500 degrés pour casser les liaisons entre oxygène et hydrogène. 2500 degrés, ça fait chaud quand même. Hein. Quand l'eau tombe dans les infractuosités de la pierre, son hydrogène est attiré par l'oxygène qui est dans les polyèdres qui constituent ce sol. Et donc, ça va casser, ça va fragmenter ces roches en roches plus petites qu'on appelle des argiles. Vous avez vu, c'est comme ça que s'usent les montagnes, les sols. Et donc, on appelle ça des argiles. Ça crée une espèce de, de peau de surface, comme la cellophane, si vous voulez, qui contient des nutriments qui sont la base de la vie, parce que les plantes ne peuvent pas les extraire dans les roches dures. Il faut que l'eau vienne fragmenter tout ça. 400, il y a 450 millions d'années, les plantes ont commencé à envahir les continents. Et elles ont commencé à diviser la présence du carbone dans l'atmosphère par 20 à 25. C'est énorme. C'est ce qui fait qu'au final, ça nous a permis à nous d'exister. Grâce à la production de dioxygène qu a, qu a, qui a été émise dans l'atmosphère. On est parti du sol pour la photosynthèse, pour la respiration des plantes, pour la nôtre. Ensuite, les plantes meurent. Elles redonnent leurs atomes au sol, aux bactéries, qui à leur tour vont détruire tout ça, vont créer de l'humus et le détruire aussi, et le rendre utilisable par de nouvelles plantes. Pendant des années d'études des sols, on a trouvé que les forêts gagnaient à peu près 100 mètres par an sur la savane et les déserts dans le monde, jusqu'à ce que l'homme arrive. L'homme a commencé à faire ce qu'on appelle de l'agriculture. Au final, sur la planète Terre, vous savez que la majorité du sol, c'est de du, du, du l'eau, de des océans, et qu'après, c'est une minorité qui est constituée par les éléments émergés. Sur ces éléments émergés, il y a 22% de la surface qui est cultivable. C'est pour ça qu'on a maintenant des sols invasif, non cultivable. Et sur ces sols, il y a, on utilise pour les cultiver 70% de l'eau pure, c'est-à-dire de l'eau euh, potable, enfin de l'eau douce, euh, sur le monde en moyenne. Ça crée une mémoire de ce qu'on utilise, c'est-à-dire que les pesticides, etc., tout ce qu'on met de bon ou de mauvais, est capturé par les argiles et va s'enfouir dans le sol. Et euh, mettre des coups de charrue et creuser le sol, libère du carbone qui était emprisonné à l'intérieur. En faisant ça, en enlevant la forêt, on a créé par exemple des remontées salines avec le sel, le sel qui revient à la surface, qui créent des sols complètement salés sur lesquels plus rien ne peut pousser. C'est ce qui s'est passé par exemple en Australie dans bon nombre d'endroits. Donc non seulement on peut faire ça, mais en plus, on va faire de l'exploitation forestière et on va enlever, accrochez-vous bien, entre 0,6% et 1% des forêts chaque année. 10 à 14 millions d'hectares. Comme on l'a vu la dernière fois, là, dans les slides précédents, c'est la principale manière et la seule manière pour la Terre aujourd'hui de recapturer le carbone de l'atmosphère. Donc en faisant ça, on va aussi, on va aussi euh, augmenter l'albédo, la réverbération de la lumière du, grand, enfin, du, du, du sol, donc ça va être encore plus problématique. Et dites-vous que 20% des émissions de gaz à effet de serre, enfin du réchauffement climatique pour être exact, sont estimées être dues au Fait de raser les forêts tropicales. 20%. En faisant ça, on fait aussi euh, sécher et fondre le permafrost, que j'ai dit tout à l'heure, qui libère une quantité de carbone dans l'atmosphère qui est énorme, sur lesquels les arbres comptaient aussi beaucoup. C'était eux qui aussi parfois ombrageaient tout ça. Et au final, on a besoin de plus en plus de terres cultivables, et on a besoin d'étendre de plus en plus les villes. Chaque jour, dans le monde, il y a environ 200 hectares qui sont perdus pour créer des villes. Chaque jour, 200 hectares disparaissent. Alors pour récapituler, on utilise de l'énergie pour bouger des items, des objets, de la matière, des atomes, pour les assembler à notre manière, à notre convenance, et on utilise des composés de matière, des molécules, pour les exploiter. C'est une vue très schématique, mais vous, allez, vous avez en gros l'idée. Et on les utilise de manière beaucoup trop... Rapide. Vous vous rappelez de ces petits graphiques dégueulasses que j'ai fait sur les énergies renouvelables non renouvelables ben, On l'utilise tellement vite que ne se renouvelle plus assez vite. Il n'y a que le soleil et le vent qui sont toujours de notre côté. L'agriculture, la pêche, euh, l'exploitation forestière, tout tombe tellement vite que le monde, la nature, le, le, la biosphère n'arrivent plus à suivre notre rythme de développement. À propos de 2020, je ne vais pas vous dire que le SARS-CoV-2, ce virus saloperie qui est apparu et qui nous a bien bouffé notre monde, est apparu directement comme conséquence du réchauffement climatique. Mais les mécaniques du réchauffement climatique et de la biosphère sont extrêmement en faveur d'une augmentation de l'activité microbiologique, ce qui inclut l'activité des bactéries et l'activité virale, leur recombinaison, leur mutation, etc. etc. Et en 2020, pour la première fois, on a vraiment eu des pénuries de production de matériaux très communs. On a pensé que ça venait de la spéculation et pour certains cas, <coughs> <les> crypto <-monnaies, coughs> ou, euh, des crypto-monnaies ou de matériel informatique ou ce qu'on voulait. Mais en vrai, le cuivre, les semi-conducteurs, euh, les plastiques, le bois, euh, le caoutchouc, le métal, les produits euh, cosmétiques, les, cellules, les, 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 les circuits électroniques... Euh, les portables, les matériaux de construction, le bois, il y a vraiment des listes d'attente pour des produits de niche pour la première fois. On a eu tous un réflexe de se dire c'est forcément lié au Covid, à la crise du Covid. C'est un raccourci qui est facile à prendre parce qu'encore une fois il est évident. Mais si on regarde de plus près les approvisionnements, les supply chains, la production, s'est jamais vraiment arrêté et la demande a continué de croître. Surtout maintenant que la pandémie commence très légèrement à se stabiliser. C'est très dur euh, de percevoir, de comprendre et de réaliser qu'on a déjà mis un pied dans la crise depuis bien longtemps et qu'elle commence vraiment à nous concerner de près, cette crise des matériaux. Mais vous savez quoi C'est pas nouveau tout ça. On a été au courant de ça depuis un certain temps. En fait, la première fois qu'on a exprimé publiquement et qu'on a trouvé des traces d'études sur notre impact à nous sur le climat, ça date il y a plus de 120 ans. Et euh, la première personne à être créditée pour avoir trouvé euh, l'idée que qu'il pouvait y avoir un danger là-dessus, c'est euh, l'esprit brillant de Joseph Fourier, mathématicien français, euh, en 1824-1827, qui a publié deux papiers dans lesquels il a dit qu'il y avait un risque, un lien entre l'activité humaine et le climat. Et depuis, on n'a jamais cessé de faire des progrès et d'avertir les gens. En 1972, des scientifiques du MIT à Boston ont créé et ont publié un rapport extrêmement sollicité, près de publicité, euh, qui s'appelle The Limits to Growth les limites à la croissance, qu'on appelle aussi le rapport Meadows, parce qu'il a été essentiellement créé par euh, deux personnes euh, dont la famille était Meadows, qui était en mémoire euh, mariée et femme, je crois, euh, produit par, pour, un, pour un groupe d'une centaine de spécialistes d'élite, des politiciens, des économistes, euh, des diplomates, des scientifiques, euh, des hommes d'affaires, etc. Et son but était d'étudier la dynamique de la population humaine et dans son environnement de voir à travers la modélisation quel impact ça avait sur la planète. Depuis sa publication, il y a à peu près 30 millions de copies qui ont été vendues dans 30 langues différentes. Autant vous dire qu'il a été extrêmement lu. Il avait trois objectifs. Récupérer des données sur les limites de notre système, de notre monde, et les contraintes que mettait l'activité humaine sur ces nombres et cette activité. Identifier euh, et étudier les éléments dominants et leurs interactions, et les influences à long terme euh, du comportement qu'on avait dans les systèmes fermés de notre monde. Avertir éventuellement sur les les conséquences économiques contemporaines euh, et par rapport à la politique industrielle qu'on avait, etc., euh, et une vue sur l'influence que ça pouvait avoir de, sur la création et la maintenance d'un style de vie qui pouvait être soutenable à long terme. Ce report a été extrêmement mal interprété par beaucoup de monde et n'a quasiment jamais donné de conclusions dures et, euh, et, et précises. Il n'y en a quasiment aucune dans le rapport et euh, par contre c'est une bonne prospective et de la science spéculative et des calculs, ce n'est pas une boule de cristal. Ce sont que des scientifiques qui sont penchés là-dessus. Mais malgré ça, il a conclu quand même à quelque chose que vous pouvez trouver intéressant. Je vais essayer de vous traduire vite fait en français euh, les trois principales conclusions qu'il a amené en trois points. La première, le rapport disait si la tendance mondiale de croissance se maintient en termes de population mondiale, d'industrialisation, de pollution, de production de nourriture, de d'épuisement des ressources, et que rien ne change et que tout continue comme aujourd'hui, les limites de la croissance de la planète devraient être atteintes quelque part dans les 100 prochaines années. Le rapport date de 1972. Le résultat le plus probable serait un déclin soudain et incontrôlable de population et de capacité industrielle. Deuxièmement, il est possible de modifier ces conditions et cette tendance, euh, et d'établir une stabilité économique et écologique, de conditions généralement acceptées par tout le monde, qui serait soutenable euh, loin dans le futur. Autant vous dire qu'on pourrait se reposer sur autre chose d'ici là. L'état de l'équilibre global pourrait être euh, conçu de sorte à ce que les besoins matériels de toutes les personnes sur Terre soient satisfaits et que chaque personne ait une chance égale de se réaliser et de réaliser son potentiel d'être humain individuel pleinement, comme tout le monde. Si le monde décide de survivre pour cette deuxième version, c'est-à-dire celle où on se donne une chance à tous plutôt que la première, plus vite on commence à s'y atteler, plus grandes sont nos chances d'y arriver. Autrement dit, si on continue le business as usual, c'est-à-dire le, le, le monde comme avant, on se dirige vers un effondrement global. Graham Turner, un physicien euh, australien, a pris les données de ce graphe et a de manière très précise calqué 5 décennies depuis ce rapport euh, par rapport aux prévisions, ce qui nous donne ce graphe. La ligne en gras représente ce qui est réel, ce qui a été constaté, le rapport qui a été fait, euh, étant en ligne, euh, les estimations étant en ligne pointillée. Donc si vous regardez ce qu'il y a dedans, vous vous dites que non seulement ce rapport a été très euh, clair dans les intentions générales, mais il a été très précis dans les mesures qui ont été données. En gros, ils avaient conclu à deux modèles, essentiellement, euh, qui ont marché pendant plus de 40 ans sans aucun problème quasiment jusque-là. Le premier des scénarios, il y en avait plus que ça en fait, mais euh, on en a retenu deux essentiellement, était celui qui nous amenait à un échec complet, à une, un effondrement vers 2020-2030, et plutôt vers 2050-2060 pour le second. C'est-à-dire qu'en gros... Euh, il y avait un, un déclin annoncé, mais pas un effondrement réel, qui aurait lieu quelques années plus tard. Voilà. Si vous pensez que c'est un problème, rappelez-vous qu'à cette époque, ils n'avaient même pas conscience du changement climatique. Ils n'avaient même pas idée de ce que la première partie de cette conférence que je vous fais là existait réellement. Ils avaient des doutes, mais ils n'avaient absolument pas tout le recul qu'on a aujourd'hui pour le savoir. Donc voilà. Ils sont basés essentiellement pour ça sur un facteur, la, le pic de production pétrolier, c'est-à-dire le maximum atteint au-delà duquel il y a un déclin. Le premier aurait lieu en 2025 et le deuxième en 2050. Alors comme je vous ai dit, au niveau de la rareté des matériaux et la perte des molécules, on va sûrement manquer de pas mal d'énergie et parfois il y a des bonnes et mauvaises nouvelles. Effectivement, quand je le dis, on fait face à une fin imminente qui va arriver d'ici peu de l'extraction du pétrole. Alors, ce ne sera pas une fin abrupte, on va encore en trouver pendant probablement 100 ans du pétrole, sans problème. La question, c'est combien on va en trouver de manière euh, consensuelle et suffisante Il y a essentiellement deux types de pétrole, euh, c'est plus compliqué que ça, mais je vais résumer de manière simple le pétrole conventionnel et non conventionnel. Le pétrole conventionnel sont les ressources. Euh, qu'on va trouver de manière simple, on va faire des trous dans le sol et il y a du pétrole liquide qui jaillit, et on s'en suffit. Euh, c'est ce qui est le plus économiquement intéressant, parce qu'il oui, y a qu'à se baisser pour ramasser. Euh, le pétrole non conventionnel, c'est celui dans à partir desquels on va trouver des formes géologiques plus délicates, comme par exemple du sable, ce qui est pas mal, ou plus difficile, de la roche qui contient du pétrole, qu'il faudra casser, fragmenter, fracturer qui va demander encore plus de matériaux pour extraire. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, le pétrole va coûter très cher, voire même va demander beaucoup de pétrole. Donc au bout d'un moment, il faudra plus de pétrole pour aller chercher le pétrole qu'on veut qu'on va en retirer. Ce qui ne serait pas une bonne chose. Bon, pour savoir si un gisement est rentable ou pas, il y a des normes aussi. Et on fait des distinctions entre une réserve exploitable et une réserve non exploitable avec le diagramme qu'on appelle la boîte de Machiavelli. Un diagramme qui classifie les ressources. Et on l'a vu, donc il y a des ressources diffuses y en a un peu partout sur la planète, mais il faut pouvoir aller les chercher. Donc voilà, même pour le gaz ou pour le pétrole, voilà. Donc c'est très 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 compliqué. Et donc au moment où vous êtes en pure dette si vous allez chercher des ressources dans le sol qui sont plus dures à récupérer que ce qu'on avait fait jusque-là. Euh... Donc voilà. Euh... Par exemple, je l'ai dit, le, le, le... on a ce qu'on appelle le shell oil, les... Le, le le pétrole de schiste, le, le gaz de schiste, le, 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 le sable bitumineux, euh, le, le gaz concentré, le shale gas, tight gas. il y a beaucoup, beaucoup de manières d'extraire le, le, le pétrole et le gaz du sol. En général, c'est une fracture hydraulique faite avec de l'eau, avec mélangée avec des produits extrêmement euh, corrosifs. Enfin, c'est vraiment très compliqué. Et euh, on utilise de la vapeur aussi pour euh, drainer par gravité, pour extraire le, les bitumes les plus lourds euh, à l'intérieur. Enfin. Tout ça, ça consomme et ça coûte beaucoup plus que ce qui était avant euh, l'extraction du gaz et du pétrole. Donc en gros voilà, si on combine ces deux exploitations, vous voyez donc le pétrole conventionnel le conventionnel, vous voyez qu'on a passé plus ou moins en 2007-2011 euh, selon où on mesure euh, selon l'endroit du monde où on mesure, mais de manière globale euh, on va dire 2011. Le, le pic de pétrole conventionnel qu'on n'a jamais dépassé depuis. C'était le maximum de ce qu'on a extrait et ça n'a jamais cessé quasiment moyenne de décroître depuis. Alors il y a des bonnes nouvelles de temps en temps, mais vous voyez que la tendance générale est à la baisse. La tendance générale est à la hausse sur le pétrole non conventionnel, sauf que le pétrole non conventionnel n'est pas un pétrole, mais plein de pétrole. Et plus ça va aller, plus il va devenir très très difficile de l'extraire. Donc je ne vous dis pas si ça ou pas, ça vous amène vers un désastre. Maintenant, vous avez des données, vous aurez qu'à voir par vous-même ce que ça donne. Tout ça nous amène à un espèce de moyen Âge, euh, une vie de moyen Âge euh, et rien de plus. Pas vraiment. Euh, parce qu'on a fait beaucoup de progrès d'ici là. Est-ce que ça veut dire qu'on va tous mourir Non. Même dans les pires scénarios imaginés, l'extinction de la vie sur Terre et de la vie animale et de la nôtre sera absolument impossible. Ça nous ramène au pire à à peu près un milliard de personnes sur Terre. Le meilleur des scénarios euh, nous amènerait avec une, une espèce de fin de croissance soutenable à 15 milliards de personnes sur la planète, qui vivraient à peu près bien et qui auraient encore euh, une planète qui soit vivable, habitable et qui aille mieux. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'il y aura des guerres C'est relativement improbable. Est-ce que ça veut dire, parce qu'on il faut, il faut, a vu tout à l'heure des matériaux, des ressources, faire enfin, des guerres, et quand il n'y en a plus, il n'y a plus de guerre. Est-ce qu'il va y avoir par contre des guerres civiles et des clashs à l'intérieur des, des pays, à l'intérieur des frontières Ça c'est plus que probable. Dans de très rares cas, l'histoire montre que ce, dans que, ce, que ça, que ça n'est pas arrivé, mais euh, grosso modo, ça arrive de manière assez systématique. Et euh, voilà, c'est une manière compliquée de résumer toutes les choses, mais bon. Alors, à quoi d'autre il faut s'attendre J'en sais rien. Euh, le transport va être sûrement menacé par ces conclusions. Le marché de l'emploi euh, va être menacé aussi, ce qui est une très bonne chose. Les aspects superflus de nos existences vont être euh, menacés aussi. Quels sont les aspects superflus de notre existence C'est pas à moi de vous le dire ce qui est et ce qui n'en est pas. Ce que je peux vous dire, c'est quand ça va arriver, on va tout de suite filtrer très vite. Et on va voir très vite ce qui est superflu et ce qui n'est pas. Tout ce que je sais, c'est que gérer un monde en croissance, c'est facile. Comme on dit un, un, un homme d'affaires français, dans une période de croissance, il n'y a pas de mauvais manager. Moi je vous dis, dans une période de décroissance, il n'y a pas de manager du tout. Euh, mais gérer l'économie en contraction, c'est clairement une autre, une autre affaire, quoi. Euh, et ça va générer des tensions euh, quand ça va arriver. Voilà. C'est à chacun d'entre nous euh, de faire du mieux qu'on peut quand tout ça arrivera, si ça arrive. Je remets la fenêtre parce que... Donc, maintenant qu'on a fait un petit voyage autour du monde, on va essayer de zoomer un peu sur le secteur du numérique et celui qui nous intéresse aujourd'hui. La première chose qu'il faut penser, c'est à quel point on est lié au numérique aujourd'hui et pour qui c'est euh, toujours été un concept qui vivait avec nous. En fait, on vit en, en symbiose avec le numérique. En fait, alors euh, cette conférence n'est pas une conférence sur le transhumanisme. Il y aurait beaucoup trop de détails et de choses à expliquer dessus. Et comme je l'ai dit, rien que le mentionner va être compliqué pour beaucoup si on continue là-dessus. Euh, comme vous l'avez noté avant. J'utilisais beaucoup de termes qui sont souvent vus... Il y a eu beaucoup d'opinions de... de... et de vues sur le numérique. Euh... Vous vous souvenez qu'à travers l'histoire, on a eu des exemples un peu extrêmes. Il y a des gens qui ont tenté de mettre des noms sur ces personnes qui s'enferment en jouant des jeux vidéo. Euh... On l'a vu pas plus tard que les deux semaines avec la Chine dessus. Et tous les vieux réacs, en fait, en période de contraction, vont avoir tendance à penser que ce qui est un progrès lié au numérique est une décrépitude pour l'humanité. Vous vous souvenez de ces lois, ces décrets sur les autorisations des smartphones dans les lieux publics, dans les écoles, euh, l'utilisation derrière. Euh, enfin voilà, vous vous rappelez de tous ces endroits où on a trouvé que c'était cool et un peu euh, retour aux sources que d'oublier les les, les les éléments numériques, euh, ces endroits où ils sont interdits, où on met des brouilleurs de réseau, etc. Pour pas que les gens les utilisent, etc. Vous vous souvenez en fait de tous ces tous ces rapports, tous ces articles, toutes ces actualités plutôt conservateurs, plutôt conservationnistes en fait sur le sur les, les, les précédents quoi. Donc en gros, le numérique souffre de un attribut positif et négatif à la fois. Et ce qu'on peut dire c'est que pour l'instant en tout cas, son développement n'a pas beaucoup changé euh, la face de la planète Terre. Ça n'a pas changé grand-chose sur l'économie et sur le la croissance de la planète. Donc ça remplace des choses qui auraient eu lieu avant et de manière différente. Ça les simplifie. On va voir pourquoi ça pose un problème après. En gros, aujourd'hui, on estime que ça fait à peu près 4% de la pollution des gaz à effet de serre dans le monde, le monde du numérique au sens large. Alors, au sens relativement fer et pas forcément large, parce que selon comment on compte, il y a des méthodologies qui montent beaucoup plus que ça, et qui disent que ça pourrait prendre jusqu'à 11%. Euh, évidemment, par exemple, est-ce que vous comptez, je sais pas, par exemple, les, les voitures euh, qui polluent, des gens qui vont travailler dans le secteur du numérique dans le monde entier Vous voyez, si vous faites ça et que vous dites, ils travaillent que parce qu'il y a du numérique, ils ne pas autrement, euh, on peut biaiser les données pour aller compter. Beaucoup plus que ça. Je veux dire, encore une fois, c'est vraiment une question de comment on compte et de la méthodologie de comptage. 4%, c'est l'équivalent de toute la flotte de camions dans le monde en pollution. Celle qui roule avec du pétrole. Et euh, ça monte. On se dirige progressivement vers un 7%. 7%, c'est la quantité totale euh, des émissions à effet de serre des voitures dans le monde. Comme vous le voyez, euh, c'est à peu près un sixième euh, de l'énergie dans le monde, euh, au niveau de la consommation euh, qui est estimée être à terme ce qu'on va atteindre, si vous voulez. Donc, encore une fois, rappelez-vous que en fonction de la méthodologie, vous n'aurez pas forcément les mêmes données. Euh, je vous ai dit, on consomme à peu près, euh, aujourd'hui, 23 000... Euh, 23 TWh. Donc, on en est à peu près là-dessus, mais euh, dites-vous que ça monte, ça monte, ça monte... Et que tout le monde n'est pas forcément d'accord, mais vous voyez bien que la tendance, quand même, va être assez euh, forte au niveau de l'augmentation. Donc, d'autres secteurs sont en déclin, ce qui est une bonne chose. Le secteur du numérique, pas du tout. Et si on continue comme ça, jusqu'où on vient Jusqu'où on va monter euh, en termes de, de, de pollution 10%, 15%, 20%, 30%, on ne sait pas. Euh, je suis parti de ces gens qui pensent toujours le futur de l'humanité à travers le transhumanisme, qui n'est absolument pas antagoniste euh, avec baisser les, de, les gaz à effet de serre, mais euh, il aurait fallu quoi qu'il arrive euh, commencer hier. Alors la question c'est pourquoi est-ce qu'on n'agit pas Pourquoi est-ce qu'on change pas le monde du numérique aujourd'hui ben, En fait, le monde numérique c'est comme je l'ai dit de manière générale au niveau de la pollution c'est très très dur d'agir sur quelque chose que vous ne voyez pas. Le problème est que la pollution du numérique c'est qu'en fait elle ne vient pas de là où elle est utilisée essentiellement. Quand vous avez Quelconque appareil électronique, vous ne voyez pas la pollution, vous voyez que de la valeur. Quand vous publiez une photo de vous, vous faites un live Instagram, quand vous euh, allez sur votre site de banque en ligne, quand vous allez euh, régler vos impôts, quand vous envoyez des messages à la famille pour dire on arrive ce week-end, vous n'avez pas l'impression que vous polluez. Vous ne voyez pas de la pollution, vous dites j'ai juste fait un truc qui n'existe même pas. Comment ça pourrait polluer quoi, en fait donc voilà, quand vous voyez un data center, vous voyez juste des petits bips, de la lumière, etc. Vous vous dites euh, bah, Venez, il n'y a pas beaucoup de pollution. Bon, si vous êtes rentré dedans, vous verrez qu'au niveau de la pollution sonore à l'intérieur, c'est violent quand même. Hein. Mais euh, essentiellement, ça vient du fait que les pays où la pollution est générée sont très loin des pays où le digital est massivement utilisé. C'est pour ça qu'on ne voit pas. Ce, ce, ce genre de pollution. Il n'y a pas de, de volutes de fumée dans le ciel à côté des data centers, d'habitude. Euh, sauf quand ça brûle. Mais voilà, il n'y a pas de, de, de cas rapportés d'empoisonnement à proximité euh, des appareils électroniques. À part le gamin qui a réussi à manger un smartphone, j'en sais rien, enfin voilà. Donc voilà, mais on peut agir individuellement. On peut. Parce que notre monde euh, est basé... Euh, sur le capitalisme qui ne fonctionne pas comme ça. On a vu que euh, vous pouvez ne pas être d'accord avec les structures, vous avez le choix, vous pouvez avoir euh, un avis différent, vous pouvez dire, euh, quand je dis vous, c'est la majorité des personnes euh, qui n'ont pas de pouvoir sur les structures et qui sont, euh, elles, ces, ces personnes-là, par contre, sont en minorité, les personnes qui peuvent vraiment changer les choses. Donc on a besoin de responsables avec des fortes convictions. On a besoin d'idées consensuelles basées sur euh, la lumière, sur la connaissance, en fait. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a l'inverse. On a des dirigeants faibles qui, soit prennent la majorité pour se faire élire, soit sont des propriétaires possédants qui font quoi qu'il arrive quelque chose en se disant le seul prisme de leur évolution à eux, c'est l'argent qui rentre y compris si ça peut générer de la souffrance, de la mortalité, de la misère, peu importe le prix à payer, pour beaucoup. Pour beaucoup, pas tous, évidemment. Mais dans nos structures contemporaines, bien souvent, la majorité des personnes, de manière pyramidale, ne décident de rien. Si vous n'êtes pas d'accord, vous êtes foutu dehors. Et c'est comme ça que fonctionne notre monde. Donc aujourd'hui, on peut commencer à voir apparaître à gauche, à droite, alors dans le pire des cas de la désobéissance civile, des démissions, des départs, des insubordinations parfois, ce qui effectivement est le la manière de se sortir de ça la plus brave et la plus courageuse, mais c'est pas la plus efficace, c'est juste la seule qu'on ait à disposition. Les boomers, comme on dit, ils ont été là depuis des dizaines et des dizaines d'années et maintenant on a la preuve qu'ils ont agi en majorité et qu'ils ont tué et dégradé progressivement la biosphère et qu'ils sont arrivés à tous les constats que je vous ai mis depuis les 100 slides qu'on a vus jusque là. Mais tout est en train de changer et en Comment savoir émerger des changements. Parce que tout le monde n'est pas une espèce de, de, de mule entêtée qui souhaite polluer et qui n'a rien à foutre de rien. Et tout le monde n'est pas sous une hiérarchie euh, couverte par la loi, euh, anti-écologiste et qui ne serait pas au courant de ce qui se passe. Les choses sont plus complexes que ça. Il y a une prise de conscience et tout le monde commence à comprendre qu'à partir de maintenant, on va entrer dans un moment avec un décompte très rapide. Ou peu importe les opinions des individus et ce qu'ils pensent qu'ils deviennent d'une année sur l'autre, leur business, qu'il soit public, privé, partiellement public, privé, ce que vous voulez, sera menacé. Que ce soit un état, un individu ou une structure. Tout autour du monde, c'est le cas depuis plusieurs années, les gens ont commencé à quitter leur boulot pour des raisons éthiques. Pour eux, pour les autres, pour plein de raisons. Depuis le début de la pandémie, ça a été plus loin que jamais. Les gens commencent à partager en direct et à le rendre de manière virale. Les moments où ils changent, où ils quittent le moment de la société, etc. À cause des petits chefs, à cause du harcèlement, à cause de la toxicité professionnelle, des conditions de travail, d'intimidation, l'homophobie, la transphobie, le racisme, à cause des conditions de travail. Et de plus en plus de personnes quittent leur boulot, euh, euh, tout simplement parce que les gens avec qui ils travaillent sont euh, merdiques. Il n'y a pas d'autre mot. Je vais simplifier pour gagner du temps. Un autre phénomène que j'ai pu voir, voir, constater au passage, qui est différent, la réorientation. J'ai deux amis que je ne nomme pas, mais je pourrais en parler. Le premier était community manager pour une marque de jeux. Le deuxième était project manager, chef de projet. Donc les deux travaillaient dans l'IT, le numérique. Devinez ce qu'ils font aujourd'hui. Les deux ont quitté la région où ils habitaient, qui était densément peuplée, essentiellement région parisienne, et ils sont apiculteurs. Parce qu'ils arrivent à en tirer des revenus, ils sont heureux, ils ont compris que les abeilles étaient extrêmement menacées et que le reste du monde allait couler avec les abeilles. Parce qu'elles sont centrales dans le monde, comme les fourmis, et que du coup, il y avait moyen de se faire de l'argent avec ça. Donc du coup, avoir une éthique, avoir une utilité et continuer de se faire de l'argent, c'est quelque chose qu'on arrive à trouver de plus en plus. Et je m'attendais vraiment pas à voir ce genre de truc là aussi souvent. On a un ancien ministre français qui fait ça aussi, à sa manière. À travers ma carrière, j'ai travaillé pour plein de gens qui étaient engagés dans la en faveur de la destruction du monde de ce que je vous ai montré jusque là. Euh, du coup la création de contenu à peu qualité mais en masse histoire de spammer les gens pour vraiment produire polluer et générer de la pub distraire les gens et les informer euh, produire des contenus vraiment absolument anti éducatifs certains étaient même xénophobes euh, de l'extrême droite ou de la droite euh, habituelle euh, qui était la droite bourgeoise classique qu'on avait jusque là euh, de manière synthétique en fait des gens qui approuvaient passivement euh, le fait de faire du mal ou de tuer d'autres personnes. Même avec la réalité sous les yeux qui disait « Mais je fais ça toujours par idéologie. » Pendant longtemps, j'ai cru que bah, les gens, en fait, on pouvait rien vraiment faire parce qu'en fait, c'est eux qui tenaient le portefeuille. Ce que tout le monde répétait de bouche à oreille. Mais en fait, le portefeuille se réduit aujourd'hui. Beaucoup plus vite qu'on le croit. Donc, posez-vous la question. Vous voyez l'impact du Covid-19 sur, on va dire depuis le début de 2020, sur l'activité de 2020 Ça... Décruit d'à peu près 4% pour la plupart des gens. Imaginez ce que serait le monde dans lequel on va descendre de 90% d'activité. Je vous laisse imaginer ce que ça va faire. Alors oui, malgré tout ça, euh, travailler dans un secteur, c'est toujours de plus en plus un réceptacle, un réceptacle aussi pour les, les bullshit jobs. Euh, C'est-à-dire c'est perçu comme étant un endroit où on fait plein de boulots qui servent à rien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une manifestation normale, une excroissance, les services et le bullshit jobs, d'ailleurs aussi, des machines qui travaillent pour nous. Parce que quand on aura moins de ressources et moins d'énergie, très vite, on va arrêter de remplir des feuilles Excel pour des gens qui s'en foutent et des lignes de slides. Euh, et on va recommencer à aller planter des champs, arroser des plantes, euh, peler des patates, enfin voilà. Tout ce qu'on fait n'est pas désiré et voulu par le reste de la population. Tout ce qu'on fait n'est pas cool. Il y a des milliers de groupes en ligne, sur Reddit, sur Facebook, sur Twitter, sur TikTok, etc., qui racontent et qui ont une narration assez claire des histoires absurdes qui émanent de nos structures. En fait, vous n'avez jamais vraiment idée de ce que votre réputation est à l'extérieur. Parce qu'en fait, à cause de la sécrétion des algorithmes, on va voir par exemple, on peut en reparler, mais imaginez comment les journalistes n'ont pas vu venir la victoire de Trump en 2016, les algorithmes ne vous montrent pas. La sélection des contenus ne vous montre pas euh, ce que vous devez voir, ce que vous pouvez voir ne vous montre plus une facette réelle du monde, mais celle qui vous intéresse. Et donc du coup, voilà, attendez, je ne suis pas en train de vous dire que vous devriez tout condamner et quitter n'importe quel job pour n'importe quoi. Vous devez parler aux gens, vous devez d'abord être éclairé, avoir de vrais arguments solides. Et euh, même des gens qui portent une cravate ou un up-up ne -up sont pas forcément des idiots. Ils sont même capables de comprendre tout à fait autant que vous. Et c'est le but. Parce qu'on va revivre ensemble et que peut-être dans le monde de demain il n'y aura plus de cravate. Ça va être compliqué. Donc, à un moment donné, ils vont être dans la même merde que vous. Donc aujourd'hui, même si vous regardez ce qui va se passer, bah, très clairement, les gens qui ont plus de capital vont perdre plus que vous. Comme à chaque fois qu'il y a une crise, une guerre, une famine, ce que vous voulez, plus vous êtes riche, plus vous perdez. Et en plus, tout ça va pas se passer en une heure. Ça va être beaucoup, beaucoup plus subtil que ça en a l'air. Alors, vous avez des droits. Vous pouvez refuser des missions, refuser des jobs. Vous pouvez dire que vous n'êtes pas d'accord et que vous ne devriez pas travailler pour cette société hyper toxique qui a une très mauvaise réputation et que petit à petit, les gens vont apprendre autour de vous que vous travaillez pour cette société-là, que ça ne serait pas drôle et qu'aucune structure ne veut ça. Des relations publiques et une image publique dégradée. Personne ne veut que afficher publiquement que ces, ces, ces clients sont des personnes qui vont euh, construire des produits euh, cancérigènes qui vont émettre beaucoup trop de gaz à effet de serre, qui n'ont pas d'éthique, etc. Ça passe très très mal dans la vie publique aujourd'hui, ça. Donc vous pouvez parler avec vos équipes, avec vos agences, avec vos structures. Personne n'engage des gens pour les faire travailler contre la survie de la planète. Personne ne veut laisser ce genre de traces derrière lui, malgré ce qu'on pense. Personne. Même les plus hauts et les plus gros capitalistes du monde. On va voir un peu après ça. Tout le monde est humain et tout le monde peut changer tout. Ça peut prendre du temps. Et le temps, malheureusement, ce n'est pas quelque chose qu'on a en trop pour le moment. Il y a toujours un choix, peu importe où va l'argent, peu importe où vont vos employés, il y a toujours un choix de ce que vous pouvez faire derrière. Et quand vous commencez à réaliser, ça veut dire qu'il y a un certain nombre de jobs qui vont devoir être mis un petit peu sur le côté. Alors oui les spécialistes en développement stratégique, les directions de la communication, les spécialistes en responsabilité sociale et en social washing, en greenwashing, les quality managers, qui sont en fait des managers de la productivité. Je ne vais pas tous les lister, mais ce sont des gens qui vont, vouloir, qui vont devoir fatalement disparaître. Et en premier, c'est une sérieuse excroissance de l'économie réelle qu'on peut mettre de côté et ça fera de mal à personne, y compris à ces personnes-là. Donc il faudra s'occuper aussi. en trouver un autre boulot à la place. Donc vous comprenez maintenant que, en fait, vos relations publiques, vos plans bien huilés, votre communication interne et externe, votre publicité, votre image, votre croissance attendue, l'argent la que vous manipulez, peu importe ce que vous allez faire, vous allez être concerné. De deux manières, soit volontairement en vous y mettant dès maintenant, soit en disant, puisque personne ne fait rien, j'attends comme tout le monde jusqu'à ce que ça arrive d'un coup. Si vous savez ce que c'est d'un coup, Regardez l'angoisse qu'ont connu les gens pendant une toute petite crise ridicule comme celle du Covid-19, qui n'a fait que 4% de croissance en moins, ce qui a empêché les pays finalement de croître de 5 à 10% pour certains pays très riches. Alors imaginez ce que c'est quand on va dépasser 10%, 20%, 50%, 90%, je vous ai dit. à mon avis, ça ne va pas se passer aussi bien qu'on croit. Parce qu'en gros, le business as usual va arrêter d'être as usual jusqu'à ce que ça arrête même d'être du business. La seule question, c'est est-ce que vous voulez être les prochains boomers dangereux pour les générations à venir, y compris pour vous-même, et jouer avec le feu jusqu'à ce que le brasier vous arrive dans la gueule, ou est-ce que vous décidez d'agir Alors ok, vous allez me dire, il y a des solutions ou pas Ça, c'est un réflexe. On a des, des sociétés hyper structurées, donc on, passe on pense en termes de présence fantôme autorégulatrice. On se dit que quelqu'un, quelque part, doit faire quelque chose. Euh, et pourtant... C'est à peine considéré aujourd'hui ce que je viens de vous montrer dans la plupart des endroits. Ça commence. Faut pas dire que tout le monde est bête et que personne ne sait rien, ça commence. Alors, on est tous habitués, toutes et tous habitués à avoir des grandes solutions où on débat simplement et on résout des problèmes comme ça. Aujourd'hui, c'est l'inverse. On n'a pas une grande solution pour résoudre plein de petits problèmes, pour résoudre un gros problème, on a plein de petits problèmes et plein de petites solutions et rien qui va directement dans le sens de la logique parfois. Donc non, on n'a pas de solution magique. Pour tout résoudre aujourd'hui. Si vous regardez le monde et l'état du monde aujourd'hui, on est à peine conscient du grand vide vers lequel on se dirige et que j'ai essayé de vous décrire depuis tout à l'heure. Alors, imaginez se mettre en équipe pour trouver des solutions, c'est pas gagné. Mais d'un autre côté, euh, on a pas mal de solutions qui peuvent s'échelonner. On en a quelques-unes. Je vous l'ai dit, on devrait arrêter d'utiliser le charbon comme énergie. On devrait revoir nos besoins. On devrait euh, trouver des directions publiques et communes vers lesquelles aller. On va essayer de arrêter de s'occuper des frontières, parce que le réchauffement climatique porte bien son nom. Euh, il va d'un endroit à l'autre et ne s'arrête pas au niveau des frontières, il va partout à la fois. Euh, et puis ne pensez pas non plus que les conference of parties, les COP, vont résoudre vraiment ces problèmes-là. Euh, ces systèmes-là sont décidés sur la base du bon vouloir de tout le monde et de l'unanimité. Autrement dit, bah, quand vous êtes un pays en voie de développement qui pollue beaucoup et qu'on vous demande d'un coup de plus polluer, vous êtes obligé de dire je rentre à la maison et tout le monde va recommencer à mourir plus jeune plus tôt et la dynamique qu'on avait impulsée de progrès va devoir s'arrêter tout de suite, on va vers la régression. Autant dire que personne n'est prêt à le faire et que personne n'accepte rien. C'est pour ça que les conférences sur le climat donnent des objectifs absolument ridicules. Alors, comment faire en sorte que nos mentalités changent Comment est-ce que nos standards bougent En général, on commence avec les, les, les penseurs précoces. Euh, ceux qui ont vu venir les choses euh, avant les autres. Euh, les lanceurs d'alerte, par exemple. On a, vu, on a parlé des scientifiques, de Fourier, de Meadows. Et puis, on commence à avoir des gens qui ont de l'influence, qui rentrent dans le sujet. Par exemple, le documentaire An Inconvenient Truth de Al Gore, qui a maintenant 20 ans, et quelques posts de blog qui se trouvent encore dans, 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 sur Internet, à l'état sauvage, où des gens euh, expliquent leurs inquiétudes pour le climat, pour les matériaux à l'avenir. Ensuite... On commence, comme veut dire les Anglais, à foutre de la merde pas trop, pas trop dangereuse dans le ventilateur et on commence à considérer qu'on est arrivé euh, un petit peu aux limites de notre époque vous savez ces posts linkedin euh, cette bullshit dans votre email les signatures d'email qui vous dit que vous êtes euh, responsable économique social engagé écologique etc mais que vous envoyez toujours 50 emails par jour puis il y a 50 trucs linkedin ça va à rien et que vous continuez de faire de la pub partout de payer des allégies de pub que vous avez 50 sites des trackers partout etc et cette pile énorme de labels que les sociétés passent leur temps à empiler et à arborer fièrement toute la journée dans des gros cols, dans des kakémonos, dans des t-shirts, etc. D'accord Donc ça, c'est une prise de conscience. On commence à dire « Tiens, on va essayer de faire quelque chose, au moins de à communiquer là-dessus. » Et après, on commence à adopter des vraies normes en définissant ce qu'on a en commun. Par exemple, la norme ISO 14008. Euh pour le sujet de l'environnement. Et ensuite, en général, effectivement, on a la longue traîne de la population qui commence à être au courant du danger, qui commence à être une majorité, à faire du bruit, à interpeller les politiciens qui, à leur tour, vont de temps en temps prendre 15 minutes et pas plus pour comprendre un sujet. C'est une vraie histoire, tout ça, permanente. Hein. Un politicien aujourd'hui a trop de choses à faire, peu importe où dans le monde, pour passer plus de 15 minutes sur un sujet comme ça. Et finalement, on va essayer d'adopter le consensus pour être réélu en disant, ben, bien sûr, j'étais génial, j'ai fait ce que la population m'a demandé, et euh, voilà. Et tout ça devient des lois, et si vous êtes euh, chanceux, ça peut venir d'une constitution, et même jusqu'à une constitution mondiale. Ce qu'on aimerait aujourd'hui, mais qu'on n'atteindra pas forcément. Alors, c'est quoi notre plan C'est quoi de ce dont je parlais depuis le début Alors, avant d'aller plus loin, je vais vous faire une petite pause là-dessus. Euh, il y a un large consensus pour euh, citer Albert Einstein. Pour dire qu'il faut qu'on change de mode de pensée. Euh, il est souvent dit qu'Einstein a dit qu'il ne faut pas compter sur les gens qui ont créé les problèmes pour les résoudre, etc. Euh, c'est pas vrai du tout, on n'a jamais trouvé cette citation dans aucune phrase d'Einstein nulle part. Par contre, celle qu'on a, c'est celle que je vous ai mise là dessus, qui est extraite d'un télégramme qu'il a envoyé au New York Times euh, en 1946, et qui dit en gros qu'il faut penser différemment et il ne faut pas rester dans le même mode de pensée qu'on avait juste avant. Et c'est là que c'est la, la partie la plus compliquée et la plus subtile. En gros, pour définir un plan, il faut un but. Et regardons le but de plus près. On va pas faire des maths très compliquées, je vous rassure. On va faire des maths super simples. Vous vous souvenez que si on dit qu'en mathématiques, a égale A, c'est-à-dire moi-même, William, salut, égale moi-même, on peut écrire que A égale A fois B divisé par B, c'est-à-dire moi égale moi multiplié par le nombre de Pokémon niveau 3 divisé par le Pokémon niveau 3. Ça fait la même chose. Et on peut déneutraliser à l'infini, comme ça, une partie, voire les deux parties d'une équation vraie. Mais qu'est-ce qui se passe si on commence à le faire avec des variables qui veulent dire quelque chose Qu'est-ce qui se passe si on le fait avec des éléments qui nous intéressent Eh bien, c'est ce qu'a fait un Japonais qui s'appelle Kaya, euh, Yoichi Kaya, en 1993, à Tokyo, au Japon, et qui a développé une euh, version mathématiquement euh, stable, on va dire, intéressante, hein, de euh, une version enrichie de Paul Elrich et John Holrens, euh, une équation, une formule I égale PAT qui décrit les facteurs de l'impact environnemental, où on dit que F est la quantité globale d'émissions de carbone de la part des sources humaines, ce qu'on essaye de baisser. P, c'est la population du monde. D'accord euh, G, c'est GDP, c'est le PIB. Et E, c'est la consommation énergétique. Ou donc, G... Sur Pi, G sur P, c'est le PIB euh, par capita. C'est-à-dire, en gros, c'est le, 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 le PIB rapporté à la population. Ce qui est ce sur quoi les économistes, en général, se focalisent, qui demandent parfois à être considérés comme un indicateur de croissance ou la production par humain. E sur G désigne l'intensité énergétique du capital. C'est-à-dire, en gros, c'est un indicateur euh, d'intensité énergétique de l'économie. Combien l'économie coûte par rapport à ce qu'elle euh, vaut. Et F sur E, c'est l'empreinte carbone de l'énergie, c'est-à-dire le CO2 qui est consommé donc euh, par rejeté par l'énergie. Donc si vous prenez les objectifs de la conférence de Copenhague, on doit diviser le nombre la, la quantité totale d'émissions émises par 3 d'ici à 2050. Donc la partie à gauche doit être divisée par 3. Donc la partie à droite doit aussi être divisée par 3 parce que mathématique bah, tout ça. D'accord Donc, on va commencer par la population et la démographie. On peut résoudre ce problème en divisant la population par 3 d'ici 2050. Est-ce que tout le monde est OK avec ça Est-ce que vous pensez qu'on peut faire vraiment qu'on est capable de faire un génocide de masse Je pense que d'après deux trois bidouilles sur net, ça va être même très très, très, très dur tuer les deux tiers de la population humaine d'ici 2050 va être très, très dur. Les gens vont se cacher, et en plus, ça ne sera, sera pas les plus intéressants qui vont mourir en premier, enfin, voilà. Donc, ok, on va oublier cette idée, mais vous voyez l'idée ici. Euh, les politiques pronatalistes, ça n'a peut-être pas la meilleure idée qu'on a eue. On va penser à ça, deux minutes, on va se dire, euh, si les gens qui ont un QI plus développé ont moins d'enfants, euh, peut-être qu'ils vont plus vers la stérilisation aussi euh, Est-ce que les gens qui en ont moins de cuivre vont plus se reproduire, ce qui est le cas Enfin, bon, je ne vais pas avoir de problème avec les gens, on va se calmer là-dessus, mais malheureusement, si on étudie un peu la neurosciences, c'est souvent ce qui se passe. Donc, il y a moyen de penser à ça et de dire il faut informer les gens et avoir une politique nataliste. C'est probablement une très bonne chose. Euh, ce qu'a commencé à faire la Chine il y a quelques années, mais pas que. Bon, pour être exact, P, on s'attend à ce que ça, ça, ça soit multiplié par 1,3 d'ici euh, 2050. Donc, on passe de à peu près 8 milliards de personnes sur la planète, à 9 à 13 milliards de personnes sur la planète, on sait pas trop. Ce qui veut dire que du coup, on va avoir un autre problème, que les autres membres de l'équation vont devoir descendre encore plus. Ça, c'est pas top. Euh, et par, par exemple, si vous voulez une idée de ce que peut être la planète qui meurt... Euh, en une année et demie, euh, une, une crise hein, comme celle du Covid-19 a seulement, avec beaucoup de guillemets hein, autour de seulement, d'accord, beaucoup, beaucoup de guillemets, a seulement tué 0,56% de la population mondiale, qui de toute façon a augmenté de 1,05 parce qu'on a continué de faire des gosses. Bon, donc maintenant, on pourrait baisser euh, le PIB par personne, euh, le total, euh, donc la moyenne. Ça veut dire moins de capital, moins de valeur pour vous. Moins d'argent, moins de richesses, moins de capital, moins de choses que vous possédez, moins de choses euh, que, vous, que vous gagnez. Euh, donc en gros, euh, c'est bien ou pas Je veux dire, euh, vous pensez que c'est une bonne idée Enfin, on s'en fout de toute façon parce que c'est pas une idée, c'est ce qui va vous arriver, c'est ce qui va arriver, quoi qu'il arrive. Donc euh, jusque-là, ça a cru à peu près de 3,3% de 3 ,3%, pardon, en moyenne en 2020, on s'attend à 6% en 2021. Ouh Youpi Plus de monnaie, plus de pognon, plus... Ça veut dire que d'ici 2050, on assume, on calcule, on idéalise un, une croissance de à peu près 2 à 2,5 par an, ce qui fait que euh, les calculs, euh, les expectatives, on va dire, les, les projections euh, font que les, euh, les politiciens pourront continuer à vous non pas à vous dire pardon pourquoi il faut voter pour eux, euh, bien entendu, la révélateur. Euh, donc en gros, euh, voilà, ça veut dire quoi Ça veut dire à peu près x1,9 en 30 ans, ça veut dire qu'on va dire à peu près x2,2 sur l'ensemble, d'accord Mais donc on a un plus gros problème. Ça veut dire qu'il faut que les deux derniers termes ici, on les divise par 8 à 12. Alors, le troisième terme, on en est où Bah ben, la bonne nouvelle, euh, on a réduit d'à peu près 30% euh, sur les 40 dernières années, quoi. Donc en gros. Si on veut faire 10 fois plus, ça voudrait dire qu'il va falloir augmenter les prix arbitrairement de tout le monde, ce qui est très dur. Hein. Ça veut dire qu'il va falloir que le prix, l'île d'essence passe à 1 euro, enfin, passe à 18 euros, qu'il va falloir que le, 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 le facteur d'électricité chez vous soit multiplié par 10, euh, l'électricité primaire, le gaz, si vous payez du gaz, fois 10, etc., arbitrairement, et qu'on utilise ça pour aller mettre l'argent ailleurs. Et donc ça, c'est mal barré aussi. Reste une dernière part euh, qui inclut, rappelons-le, à l'heure actuelle, le développement de l'énergie nucléaire, de l'énergie hydroélectrique, de l'énergie des panneaux solaires. On a vu tout à l'heure à quel point ça a s'amélioré, l'énergie photovoltaïque, le développement des forces marémotrices, etc. Alors, que dire à propos de ça ben, On a fait à peu près euh, plus 10%, on a gagné 10% euh, sur les 40 dernières années. Donc on a, on a réduit le total. C'est pas mal. Donc, en fonction de, des estimations qu'on veut, il faut que tout ça, ça diminue d'un facteur de 5 à 15. On va mettre 10 en moyenne. Donc à la fin, je récapitule, de quoi on a besoin On a besoin de plus de guerres, des génocides, de diviser par 2, 3 ou 4 le capital, donc la valeur de ce qu'on a, ça veut dire 2, 3, 4 fois moins de valeur sur le compte en banque, d'objets chez vous. On a besoin de couper complètement l'énergie qu'on utilise, on a besoin de la payer plus cher, on a besoin de trouver des idées magiques qui font que l'énergie va être 10 fois plus rentable. Et tout ça, on n'a pas réussi à le faire depuis 40 ans, on doit le faire d'ici à peu près 30 ans. On va dire 20 ans si on veut arriver en euh, 2040, 2050, ça dépend quand est-ce qu'on commence à partir et quand est-ce qu'on dit qu'on veut qu'on s'arrête. Voilà. Ça a l'air génial. La question, c'est pourquoi est-ce qu'on n'est pas déjà en train de le faire Bah, on est en train de le faire, tout doucement. Ensuite, on a besoin d'un. On n'a pas besoin juste d'un but, on a besoin d'une méthodologie de savoir où on part. Alors, vous pourriez être surpris, il y a plein de pays qui ont déjà commencé à agir. Je dis, je dis encore une fois, on ne parle pas des, des conférences, des parties, des COP, Kyoto, Paris, Copenhague, etc. Mais ne euh, le, le dites pas trop vite, le dites pas trop vite, trop fort, hein, mais on a un peu commencé à s'inquiéter quand même, et ça devient visible. Alors, ce n'est pas la fin du boulot, c'est, on va dire, une, un ersatz, un petit bout de début de travail sur le sujet. Donc il y a des gens qui commencent à participer euh, au, au, au panel euh, du GIEC, et qui ont défini et clarifié des objectifs euh, qui sont à l'échelle de chaque pays. Donc euh, il y a Katie Roborf, par exemple, qui travaille beaucoup là-dessus, qui a hum, créé un espèce de framework Safe and Just Space, qui combine en fait les limites de la planète Terre, euh, telles que proposées par Yuan Rockstrom et des collègues, euh, initialement et dans ses travaux, et euh, les limites sociales de, euh, de concepts complémentaires. On va dire, il y a à peu près neuf limites, limites à la planète, avec des frontières à établir en disant, il ne faut pas dépasser ça. Euh, et puis, euh, elles ne sont pas suffisantes. Il y a aussi le bien-être humain qui doit être euh, maintenu en disant on va quand même essayer de vivre dans ce qu'on appelle une condition décente, intéressante. Donc du coup, on a déduit 11 métriques sociales et 7 métriques biophysiques, en fait, que vous retrouvez dans ce graphique. Donc ensuite, on mesure ce que chaque pays fait dessus, et vous trouverez les sources en détail à la fin de cette présentation, ce qu'on appelle euh, sûr, enfin safe and just, c'est-à-dire juste et sûr. Et ça nous donne le euh, tableau que vous avez sur la gauche. C'est pas la question de savoir qui on doit blâmer, la question c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on n'y est pas toutes et tous aujourd'hui. Maintenant, vous avez un concours, vous avez quelque chose pour démarrer, vous savez d'où vous partez, vous avez un endroit où vous devez aller. Donc le but c'est d'arriver, je le rappelle, ici en haut à gauche. Vous voyez qu'il n'y a pas grand monde en haut à gauche. Vous avez des, des, des seuils euh, transgressés et des limites physiques transgressées et des, et des, des seuils sociaux à atteindre. En d'autres termes, il faut, je disais donc, s'éloigner euh, de la droite ici pour arriver sur la gauche, s'éloigner du bas pour arriver vers le haut. Donc il ne faut pas être ici, il faut être plus possible ici. Voilà. Et tout ça est à l'échelle d'un pays. Alors je vais vous donner quelques exemples en dehors du monde digital au niveau des solutions. Pour que vous ne soyez pas persuadé que vous êtes en train de travailler tout seul et que tout le monde ne fait rien à côté, et que personne ne fait rien. Euh, il y a beaucoup de gens qui essaient de capturer le carbone dans l'atmosphère, euh, un peu partout, n'importe où, ou euh, parfois au niveau des euh, centrales. Il y a une partie des centrales qui sont en train de tester ça et qui sont d'ailleurs euh, rétro-installées, c'est-à-dire rétroactivement installées sur les centrales qui sont là depuis très longtemps, et ça fonctionne, ça fonctionne, elles arrivent à capturer une bonne partie du charbon émis. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut se précipiter, dire ouais cool, on va les brûler tout le charbon qui reste. Euh, c'est pas aussi facile que ça, ça marche pas mal, mais c'est pas non plus génial à fabriquer, donc ça pollue aussi de le fabriquer quoi. Donc il y a même des gens qui ont commencé, euh, vous voyez sur cette image, à dire on va le faire n'importe où. On va capturer le carbone dans l'atmosphère pour le remettre dans le sol, ce qui pourrait ne pas être très productif et euh, qui va plutôt concerner les États que les sociétés privées. Il y a des gens qui ont eu des super idées, comme par exemple utiliser du carbone pour refaire des matériaux. Les parpaings que vous voyez sur cette image sont en fait essentiellement composés, alors ceux d'avant aussi, mais ceux-là encore plus, à partir de composés carbone qui ont été trouvés dans l'atmosphère et ils sont super costauds et pour l'instant ils sont très très appréciés des gens qui les testent. Donc euh, essayons de faire attention, il y a des idées qui sont bonnes, d'autres qui ne sont pas bonnes. Par exemple, ça c'est un projet qui essaie de remplacer les abeilles par des abeilles robotiques. Alors le but c'est pas de les tuer, le but c'est de les assister, disait-il. Mais dans ce cas-là, le business model de ces gens-là, ça va être de dire cool, moins il y a d'abeilles sauvages et connues, moins il y a d'abeilles tout court biologiques et plus notre business va grandir. Donc voilà, l'idée c'est plutôt d'arrêter d'utiliser les pesticides, d'arrêter d'importer des frelons qui viennent euh, perturber les écosystèmes parce qu'ils sont en truc dans un endroit où ils n'ont pas de prédateurs ni rien, d'arrêter d'amener des nouvelles, de nouveaux parasites sur les abeilles, parce qu'il y a beaucoup de parasites pour les abeilles, euh, en prendre soin. Euh, Essayer de refaire pousser un peu les herbes, arrêter de tondre son gazon tout le temps, laisser un peu pousser l'herbe, euh, laisser avoir quelques fleurs, quelques plantes à tour de rôle dans les, dans les champs, les trucs autour de vous, pour que les écosystèmes en fait reviennent à la vie, c'est-à-dire laisser de la nature presque ce qu'elle avait fait au début. C'est pas que c'était génial, c'est que pour l'instant c'est ce qui nous a sauvé. Euh, c'est pas que ce soit une très mauvaise idée, c'est sûr que ça pourrait être marrant, mais bon, il faut il faut que ce soit une expérience euh, euh, de test, il faut que ça puisse être euh, euh, intéressant à regarder mais pas que ça soit un truc exploitable en masse par exemple ce truc là et puis également penser aux oiseaux qui vont bouffer ces trucs là en le prenant pour des abeilles enfin on en parlera plus, on n'en sort plus à la fin donc voilà euh, ça peut être une très bonne approche en gros, il faut donc absolument revoir nos paradigmes, notre manière de penser. Euh, la meilleure chose que nous ayons à faire, c'est de ne rien faire. Donc, à chaque fois qu'on bouge, qu'on va faire du shopping, qu'on va manger, qu'on va, qu va acheter un truc à ordinateur, envoyer des messages, faire de la messagerie instantanée sur les téléphones, qu'on va ouvrir un four pour faire quoi que ce soit, on va partir faire une balade en vélo, on va en vacances, on achète une guitare, on va chez le dentiste se faire soigner les dents, on va, se faire soigner, on, va, on va se faire couper les cheveux, etc. On arrose la pelouse, on, on, on va balancer des déchets n'importe où ailleurs que dans une poubelle et encore pas toujours même dans une poubelle, on consomme quelque chose même sans s'en rendre compte. Donc le déni d'activité, l'activité eco-friendly euh, donc euh, on va dire éco-compatible, euh, c'est ce à quoi il faut qu'on pense. Et oui, c'est un putain de fardeau sur nos vies au quotidien de voir tout à travers cette perspective-là. Oui, c'est une putain de contrainte et oui, effectivement, c'est quelque chose qui n'est euh, vraiment pas drôle, enfin non, c'est absolument pas drôle du tout. Et oui si on pense à ça et qu'on fait en sorte de faire attention à ça on peut sauver notre monde on peut sauver des vies on peut prévenir une forme de souffrance et peut-être finir dans un monde bien meilleur et bien plus avancé que celui qu'on avait jusque-là et qui pour l'instant a réussi à survivre et avant qu'on arrive sur le, sur le secteur digital je voulais juste récapituler cinq trucs qui pourraient être notre priorité. donc number one on arrête disait le charbon Numéro 2, on commence à recycler les matériaux rares et à les identifier. Numéro 3, c'est très facile. La principale raison agricole pour laquelle on rejette énormément de gaz à effet de serre, ce sont les vaches. On ne vous demande pas d'être vegan dès le début, ça serait très bien, mais vous n'êtes pas obligé d'être là-dessus. Végétarien, ça serait vachement bien déjà aussi, mais même si vous voulez commencer quelque part, ne bouffez plus, ne consommez plus rien qui vienne des vaches. Le lait, les produits... Euh, qui vient de la viande des vaches, le cuir, tout ça. Dites non absolument à ça. Les vaches, c'est une espèce de monstrueux cul sur pattes qui fait que bouffer toute la journée, c'est adorable, c'est mignon. Voilà. Et le problème, c'est que c'est un animal qu'on a un peu créé nous-mêmes et qui passe sa journée entière à bouffer et qui émet des tonnes et des tonnes et des tonnes de gaz à effet de serre pas elle-même, mais tout ce qu'on fait pour les vaches, la production, le transport, les agricultures intensives céréalières, tout ce qui va avec, les produits qui sont faits derrière, le cycle de vie complet de tout ce qui est lié aux vaches, bouffe, j'ai plus les chiffres en tête, je crois que c'est 65% de mémoire, de, euh, enfin, rejette est responsable de 65% des rejets de gaz à effet de serre dans le monde. Donc commencez par dire non aux vaches et vous irez vachement mieux. Euh, ensuite, euh, améliorer le foncier, le bâti en ne pardonnant plus jamais qu'aucun bâtiment industriel, commercial ou résidentiel, ou ce que vous voulez aujourd'hui, ne soit pas proche de neutralité, voire positif. Des bâtiments qui ne consomment plus rien, ça veut dire qu'il n'y a plus besoin de centrales pour alimenter la chaleur dans ces bâtiments. Ça, c'est un vrai truc essentiel. À quoi ça sert de chauffer des bâtiments où la chaleur part dans l'atmosphère pour rien faire derrière Ça sert absolument à rien. Et la principale raison pour laquelle euh, il faut être euh, ne pas être contre-productif et toxique pour l'humanité, c'est de se tenir au courant, c'est pour ça que j'ai fait cette conférence. Et voilà, c'est peut-être pas le meilleur des conseils, c'est le mien, je suis pas plus que ça, je suis pas un spécialiste, moi j'ai eu ce conseil là de la part des spécialistes, voilà. Et au passage, euh, si vous pensez à propos de recycler des matériaux électroniques, des euh, trucs électroniques, on va dire tous les trucs, parce que vraiment aujourd'hui il y a tellement de choses dans IoT, etc., il y a plein de choses, bah, ça marche, ça a un bon équilibre au final, mais c'est n'est pas forcément très, très euh, valeur et vecteur de récompense, parce que les gens mettent de moins en moins de matériaux rares dans les, dans les appareils électroniques. Parce qu'en fait, on a fait des progrès, on sait l'utiliser de manière moins rare, on a des substituts, et en plus, comme ils deviennent rares, bien, les gens ne les ont plus. Donc ils fabriquent moins, ils polluent moins. Donc voilà. Comme je l'ai dit, la meilleure manière, c'est de faire changer les choses euh, en connaissant mieux le sujet dans lequel on de, duquel on parle. Euh, si vous savez, vous pouvez agir. Euh, et donc les, les politiciens, les hommes de pouvoir, etc., les hommes politiques peuvent agir. Euh, ils peuvent agir en faveur de ce que vous voulez. Ils peuvent être réélus, tout ira bien. C'est comme ça fonctionne la démocratie. C'est différent dans chaque pays. Les élections sont à la fois un poison et une solution et un remède. Comme nous, sur la planète, on est des poisons et un remède à la fois. Donc voilà, après tout se mettra en marche potentiellement. Et n'oubliez pas que tout ce qui est décisionnaire politique met à peu près une, deux, voire trois dizaines d'années à rentrer en branle et à commencer à marcher correctement. La régulation met à peu près toujours 10, 20, 30 ans de retard. Donc l'état actuel des choses n'est pas une exception. On le sait depuis des années, voilà. Donc je ne vais pas aller trop vite pour vous expliquer comment on, on, on met en place, on implémente des solutions. Ce pas le but de ce talk, mais voilà. Euh, pour faire, euh, pour chevaucher un éclair si vous voulez, je vous le dis en deux minutes, on peut agir en donnant un prix aux émissions de carbone ou euh, un n'importe quoi qui convertisse euh, des émissions de carbone en équivalent, et on peut estimer euh, le prix de ce que ça va coûter, qui est très cher, et on peut dire que euh, le, le, le prix du carbone est une bonne idée, qu'il soit plus ou moins bien implémenté sur les. Donc vous pouvez taxer les gens ou inciter les gens. Euh, vous pouvez les faire payer plus et vous pouvez aussi leur donner des crédits de manière positive pour qu'ils soient utilisés pour quelque chose d'utile. Vous pouvez aussi mesurer les gaz à effet de serre émis. Vous pouvez euh, donner des réductions de taxes aux personnes euh, qui en ont besoin pour euh, améliorer les logements. Et vous pouvez aussi adopter des mesures globalement en, tant... en disant par exemple il est interdit pour les voitures de circuler à partir d'un certain poids voitures, de véhicules. Euh, vous pouvez empêcher les gens d'investir sur du non-renouvelable, etc. Euh, si vous voulez, en fait, cette carte vous montre à peu près une version plus ou moins actuelle des endroits dans le monde où les pays ont commencé à développer une économie liée au carbone. Par exemple, des ETS, des, des systèmes de Emission Trading System, dans les systèmes de, de, de partage d'émissions pour savoir comment on fait dessus, pour échanger dessus, euh, où on récupère des crédits pour ne pas polluer, où on peut acheter des crédits pour polluer qui sont redistribués pour des, dans des buts écologiques. Et comme vous le voyez, on a commencé à, à bouger. Euh, c'est trop lent, mais vous le voyez, c'est mieux que rien. Pour mesurer le carbone, euh, on a besoin d'un protocole standard. Rappelez-vous un, un, un slide précédent, c'est comme ça qu'on construit les normes et les, et les lois en fait. Hein. Donc il faut des protocoles standards, et le problème c'est que la pollution n'est absolument pas évidente. C'est pas un truc que vous mettez un mètre dessus, vous mesurez, et voilà, c'est plus vicieux que ça en a l'air. Les émissions de gaz à effet de serre sont catégorisées en trois groupes, en trois scopes, qui sont essentiellement utilisés comme système de, de comptabilité internationale. Le, le Greenhouse Gas Protocol, le GHG, qui dit par exemple le scope 1, le, c'est les émissions directes des, des sources que vous contrôlez euh, ou que vous possédez. Le scope 2, ce sont les émissions indirectes qui viennent. Euh, de la génération de ce que vous avez acheté comme l'électricité, la vapeur, la chaleur, euh, les systèmes de refroidissement, etc. par le, la société ou la structure qui les rapporte. Et les émissions de scope 3. Ce sont tous les autres, c'est-à-dire en gros ce qui est indirect et qui, pas, qui, qui va venir dans la, la chaîne de valeur de la société qu'on mesure. Donc quand vous êtes sur le scope 3, tout devient beaucoup beaucoup plus complexe, si vous voulez. Ça peut être, euh, ça peut être le, le, les employés que vous avez, quel type de véhicule ils utilisent euh, pour venir au boulot, par exemple. Et ça, c'est vachement important, et c'est un scope niveau 3. Et c'est là que vous commencez à comprendre que la comptabilité carbone est un putain de cauchemar. Donc parlons un peu du secteur digital. Euh, on a vu que la consommation globale était en hausse et que tout n'est pas dans le bon sens. Mais c'est quoi la pollution digitale Donc je lui dis, c'est une pollution qui est invisible, absolument invisible. Pourtant, on va prendre quelques équivalents. Un simple email, un email tout bête, qui est le moyen de communication toujours le plus utilisé dans le monde aujourd'hui, émet 10 grammes de CO2 pour être euh, envoyé et reçu. C'est à peu près la quantité qu'un arbre, un arbre adulte, peut absorber en moyenne en une journée. On peut pas le voir c'est comme les gaz d'échappement ou les pollutions dans les rivières, on ne le voit pas toujours directement. Envoyer un email avec un, 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 un mégaoctet de pièces jointes, c'est la même chose qu'un ordinateur en veille toute une nuit et on envoie 300 milliards d'emails par jour. Et ça, c'est juste l'email. N'oubliez pas que c'est le numéro 1 au niveau de la communication dans le monde, mais que c'est un protocole qui est vieux, qui n'est pas très optimisé, qui consomme un peu trop d'énergie, qui n'offre pas une expérience géniale, mais ça a fonctionné. C'est devenu une espèce de chimère avec l'imap, l'HTML, les mails, la sécurité, etc. Mais ça fonctionne toujours. Et disons que c'est pas la technologie la plus évidente pour tout le monde, mais c'est pas non plus la plus évidente à mettre en place. Il y a des normes, il y a des standards de facto, tout le monde n'est pas d'accord, les emails ne sont pas tous compatibles entre eux, etc. Donc c'est vraiment un boulot à faire fonctionner. Quoi. Et dites-vous que ça, c'est rien. Imaginez les milliards de messages envoyés chaque jour à travers les autres applications euh, de WhatsApp, de Instagram Messenger, de, 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 de toutes les applications de la planète, euh, sur les messages privés, sur Twitter, enfin. Toutes ces applications-là, pensez aux SMS, aux MMS, etc., etc., etc. Et tout ça n'est pas ce que vous voyez. Vous ne pouvez pas y prêter attention et du coup, vous laissez toute cette information qui ne sert absolument à rien au final mourir dans un coin. Et en général, quelques jours après, vous êtes incapable de citer les messages ou qui vous a écrit quoi et quand. Alors revenons sur le sujet. En supposant que ça ne soit pas visible, d'où ça vient D'où viennent les émissions alors du, du digital puisqu'on ne les voit pas ben je vais vous le dire, ça vient en fait de plein, 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 plein de sources différentes, mais ça vient essentiellement de deux endroits. Ça vient la première fois de ce que vous, a, ce que vous achetez, et la deuxième, ça vient de ce que vous utilisez. Voilà une estimation globale d'où vient la pollution du digital. Et comme vous le voyez, elle vient de plusieurs secteurs et de tous les types. Euh D'utilisation possible, c'est très partagé, quoi. ça vient d'un peu partout. Quoi. Alors vous trouverez des, des utilisations, des sources différentes sur le net qui disent qu'en gros, selon ce qu'on considère, ça peut aller jusqu'à 75% pour la pollution euh, due à la production en fonction de votre méthode de comptabilité. Donc à propos de la production, c'est la moitié du problème. On va, on va commencer par s'intéresser à ça. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous, construisez vous achetez quelque chose, pardon, les constructeurs en construisent encore plus. Et si vous, achetez, si vous arrêtez d'acheter, ils arrêteront de fabriquer. S'ils arrêteront de fabriquer, on arrête la moitié du problème. Bien sûr, ils n'arriveront pas à zéro, parce qu'à moins d'abandonner complètement le numérique, ce n'est pas la direction qu'on prend. Donc, il faut savoir, par exemple, pour produire un smartphone, on a besoin de bouger à peu près 40 fois son volume et de le sortir du sol en terre, en matériaux. 40 fois son volume. Si vous pensez que c'est juste un petit peu de matière et d'énergie, euh, repensez à, ça à nouveau ce truc-là un peu mieux. On a besoin de 80 fois plus d'énergie. Pour faire l'équivalent d'un gramme de smartphone, que pour faire l'équivalent d'un gramme de voiture. Donc, si les smartphones pesaient autant que les voitures, on aurait besoin de quantités démentielles. Euh, à propos des matériaux aussi, on parle souvent aussi vous savez de sacs à dos écologiques, de backpacks, qui sont virtuellement portés par les appareils électroniques, euh, parce qu'en fait, il y a plein de petites parties des matériaux, donc des centigrammes parfois, qui nécessitent de bouger des dizaines et des dizaines de kilogrammes, de voir des tonnes de matière pour être trouvées. À propos de l'utilisation, la deuxième partie. Si on se contente de ça, donc jusqu'ici, si vous voulez, euh, en dehors des, en dehors des, 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 des besoins en de croissance de chacun des appareils, en fait, on a augmenté l'efficacité énergétique des appareils, les smartphones, les ordinateurs, etc. Donc, on a à peu près contenu. Euh, la croissance de la consommation d'énergie. Les, les data centers à hyper échelle, en fait, sont, sont de plus en plus efficaces. Les, centres, les data centers euh, publics de données, etc., sont de plus en plus efficaces aussi. Ceux qui sont essentiellement opérés, possédés comme des sociétés comme Alibaba, Amazon, Google, BlackRock, ou Microsoft, rentrent dans cette catégorie. Les data centers dans le monde, on estime qu'ils consomment à peu près 200 TWh d'énergie en 2020 à peu près 3% de plus que 2014, malgré le fait qu'ils ont triplé en volume en existence en conséquence. Avec comme conséquence des nouveaux services qui émergent, la transformation digitale, les, 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 les types de contenus qui se sont améliorés, on est passé du texte à l'image, au son, à la vidéo, la vidéo augmentée, à la réalité virtuelle, etc. Et euh, les réseaux de données, qui sont l'équivalent du système nerveux euh, du monde, en fait, des liaisons nerveuses, consomment à peu près 185 terawatts euh, en 2015. Bon, ça, ça augmente aussi depuis, mais à une échelle relativement contenue. Comme vous le voyez, en fait, on a de plus en plus de serveurs euh, qui sont de plus en plus des machines comme votre, comme votre ordinateur, hein, qui sont euh, échelonnables, réparables, supprimables, soignables, etc. pendant que vous travaillez dessus. Hein. Euh, on a de plus en plus de data centers à très grande échelle, c'est-à-dire des milliers de machines et plus, et les sociétés qui utilisent ces trucs-là dans le monde gagnent en proportion de l'importance. Donc on en est là, il faut surveiller ça. Et ces serveurs, en général, atterrissent là-dedans, dans les data centers, euh, qui, euh, en fait, représentent votre consommation, euh, de, votre consommation à vous, en tant qu'individu, et les euh, transmissions réseau qui vont derrière ça. Ce sont des gros bâtiments qui sont pleins d'ordinateurs en forme de boîte à pizza qui sont stockés dans des armoires, des baies, des unités, des secteurs, etc., par milliers, par dizaines de milliers. Il y en a à peu près partout sur la planète. Euh, il y en a y compris dans le pôle nord et le pôle sud. Euh, parce qu'ils utilisent une quantité incroyable d'énergie qu pour tourner, et énormément d'énergie de ce qu'ils utilisent, euh, et se retrouvent dissipées euh, pendant qu'ils tournent, c'est-à-dire à peu près 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Et ces data centers sont pas vraiment en déclin, comme on l'a vu. Une étude récente a comparé les deux tendances, euh, l'extrapolation du monde réel et la théorie par rapport à la loi de mort, combinée avec le, l la croissance de l'IoT, l'Internet of Things, tous les petits objets qui sont reliés à Internet. Donc en gros, le premier montrait euh, les besoins euh, d'à peu près 292 terawattheures en 2016 à 353 terawattheures en 2030, et l'autre dirait qu'on irait jusqu'à 1287 terawattheures en 2030. N'oubliez pas... La consommation d'énergie totale en ce moment, c'est 23 000 TWh, à peu près dans le monde. Donc voilà, ces data centers, plus ils sont grands en fait aujourd'hui, plus ils sont efficaces en termes d'énergie. Qu'est-ce que ça veut dire avec les appareils Quand vous regardez une vidéo, comme moi en ce moment, n'importe quoi, un downstream de vidéo, c'est-à-dire un flux vidéo téléchargé en temps réel, votre appareil consomme 1000 fois plus d'énergie que quand il ne fait rien. Et c'est l'équivalent aussi, 10 fois plus d'énergie euh, quand il envoie un email à votre smartphone que quand il ne fait rien. Donc vous voyez, les, les rapports sont pas du tout les mêmes. Hein. Alors, la question, c'est pourquoi est-ce qu'on utilise tout ça Qu'est-ce qui va impacter la demande d'énergie Donc, ça, c'est un, un, un schéma global d'impact potentiel de digitalisation sur le transport, les bâtiments et l'industrie. Donc, en gros, euh, les points représentent un élément stratégique, une activité clé, si vous voulez, et euh, dans les années qui vont venir. Donc, on va même pas discuter de ce qu'on appelle stratégique parce que tout le monde serait forcément d'accord là-dessus. C'est ce qu'on a repéré comme étant quelque chose qui va s'avérer comme étant stratégique. Plus ça va à droite, plus c'est critique pour le développement. Plus ça va vers le haut, plus ça va demander d'énergie. Donc voilà, par exemple, si vous demandez à quoi ça sert, les, les points clés de ce qui va être euh, amélioré, ce qui va être critique dans les, dans les mois à venir. Donc vous avez par exemple le contrôle à distance, vous avez euh, le, le, le transport euh, sans, sans être humain pour s'en occuper, vous avez euh, le, le, les données dans l'aviation, vous avez euh, les thermostats euh, intelligents, enfin voilà, vous aurez beaucoup de choses de ce truc-là. Et les, les explications qui vont avec la méthodologie calcul vient de calcul viennent de l'AIA, elles sont toutes en source à la fin de cette présentation. Pour résumer les choses, euh, vous émettez en moyenne une tosse de GAN EVCR par an avec le digital, euh, et si vous êtes un espèce de fou comme moi, vous êtes probablement beaucoup, beaucoup plus bien au-delà de cette moyenne. Euh, ça fait à peu près un huitième de notre comptabilité annuelle de gaz à effet de serre. Alors, le monde du digital dont on parle, c'est quoi ben, Jusque-là, on a vu des proportions et des nombres relatifs, mais combien de personnes sont concernées par ça Ça, c'est le digital. Il y a à peu près des deux tiers des personnes dans le monde qui ont aujourd'hui un téléphone mobile. Euh, c'est la majorité de l'utilisation sur le web aujourd'hui. Le smartphone représente la majorité de l'activité. Ensuite, il y a les plateformes d'applications, etc. Il euh, y a plus de la moitié des gens qui ont accès à Internet euh, sur la planète depuis leur maison. Et ça monte, ça augmente, ça croît de manière très sérieuse. Vous voyez, ça monte à peu près. Donc la, la population augmente à peu près 1% par an. Et là, ça c'est les chiffres de l'année dernière. On augmente à peu près de 7,4% d'utilisation d'Internet. Et euh, si vous regardez ce que c'est que le réseau, le trafic Internet, comme vous pouvez le voir, ça s'enflamme et ça bondit vers le ciel à peu près tous les ans qui passent. Euh, si vous regardez ici les, le, l le, 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 le progrès, le progrès simplement, de l'énergie, du de, 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 de trafic annuel euh, Internet par paquet de 10 ans, 10 ans et 5 ans, vous voyez à quel point ça explose. C'est ce qu'on appelle une croissance exponentielle presque polynomiale. Enfin voilà. Et donc, regardez bien les années ça grandit à une vitesse hallucinante. La consommation de la bande passante aujourd'hui, elle est essentiellement bouffée par Netflix. Ensuite, il y a YouTube, HBO, YouTube Premium, Amazon, Pornhub, Disney+, etc. Et le reste est essentiellement partagé sur du spam, euh, votre connexion Internet, les applications mobiles, les sites web, Facebook, Instagram, TikTok, etc. Et puis le web, l'email, la vidéo games et la longue traîne de toutes les applications euh, plus ou moins utiles hein, qui existent dans le monde. Euh, je suis sur Twitch en ce moment, là quand je fais ça. Bah, Twitch aujourd'hui c'est 9,3 milliards d'heures vues par an. C'est la plus grosse plateforme de streaming en termes d'activité dans le monde. La plus grosse en audience étant Facebook, qui euh, ne fait pas que de la vidéo en streaming, etc. -dessus. Donc il y, y a beaucoup de choses à faire dessus, mais voilà. Euh, si on exclut Instagram et WhatsApp, ça reste quand même la plus grosse euh, source d'activité. De vidéos streaming. D'ailleurs, sur Facebook, il y a plus d'une vidéo sur cinq qui a été faite en direct l'année dernière et elles sont vues trois fois plus que les vidéos préenregistrées. C'est encore pire sur Instagram. Ce qui veut dire en gros que c'est 15 fois plus de trafic de vidéos en direct qu'en 2017. Euh, le mobile et l'Internet of Things euh, compte pour à peu près 30 milliards d'appareils aussi. Ça inclut les frigos, les bouteilles de vin connectées, les drones, les vaches. Oui, une vache en moyenne connectée aujourd'hui va émettre 200 méga octets de données par an ou des voitures connectées, vous l'avez vu. Euh, le nombre de smartphones, on s'attend à ce qu'il augmente de 3,8 milliards en 2016 à 6 milliards en 2020. On refait les comptes en ce moment. Le nombre d'objets de, de, connectés, on s'attend à ce qu'il triple pour passer de 6 milliards en 2016 à 20 milliards en 2020. Et si on inclut absolument tout, on peut dire qu'on devrait s'approcher des 50 milliards en 2030. C'est la raison pour laquelle certains changements technologiques euh, ont été obligatoires dans le monde, notamment IPv6 pour ce qui est des adresses dans le monde, et la cinquième génération de réseau mobile, la sixième génération de réseaux mobiles qui est en train d'être préparée aussi, la fibre optique ou des protocoles comme NBIoT ou LoRa qui sont vachement développés, euh, les micro-ordinateurs comme les Raspberry Pi, etc. etc., etc. Et dites-vous que ça ne s'améliore pas les utilisateurs qui sont les mêmes passent de plus en plus de temps sur leur mobile. À chaque fois que vous faites quelque chose, vous générez de la pollution. Quand vous regardez, que vous répondez, que vous commentez, que vous envoyez un message privé, que vous en mettez une image, que vous faites un stream, vous générez de la pollution parce que ça bouffe la batterie, parce que c'est euh, sauvegardé localement, c'est processé, c'est traité localement pour pouvoir être optimisé sur le, sur le net, c'est envoyé sur les réseaux, c'est stocké à distance, c'est présenté aux autres qui vont le lire aussi, c'est analysé pour faire de la data value, c'est transféré à travers les réseaux pour être vu, etc. C'est re-sauvegardé localement pour le cache, etc. C'est etc., 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 etc. une chaîne de pollution qui va bien au-delà du fait que vous faites quelque chose, ça va beaucoup plus loin que ça. Et comme vous le voyez, la plupart de la pollution, on l'a dit tout à l'heure, vient de la production quand on s'intéresse uniquement aux mobiles, par exemple. Ça, ça montre les valeurs pour des smartphones. C'est un peu plus polarisé quand on regarde les ordinateurs de bureau. Mais voilà, le, 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 la taille de marché n'est pas la même. Hein, L'échelle n'est pas la même. Donc, aussi, on regarde ce graphe. Il a quelques années. Euh, D'où la différence avec quelques slides que j'ai montré juste avant. Alors, si vous vous demandez à quoi ça sert, le GWP, c'est le Global Warming Potential. C'est un, un indice pour euh, exprimer les, les équivalents en gaz à effet de serre. Le ADP, c'est Abiotic Resource Depletion, c'est-à-dire l'épuisement des ressources non biotiques. Donc c'est tout ce qui est non renouvelable et renouvelable, qui n'est pas biotique, qui n'est pas lié à la vie, donc la, le vent, euh, l'eau qui coule, etc., qui n'est pas vivant. Euh, et c voilà, ces ressources incluent aussi par exemple les ressources fossiles, euh, les minéraux, etc., la construction, les rochers euh, qu'on a cassés pour faire ça, euh, l'industrie minérale, les silices, les sables silicés, le, 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 la potasse, etc. Et euh, l'ecotox c'est un, un indice écotoxicologique de toxicité et d'écotoxicité humaine, voilà. Donc en gros, vous voyez que la production est quand même vraiment, vraiment responsable. En gros, ça veut dire quoi Quand vous changez de n'importe quoi, un micro, un appareil électronique, un câble, n'importe quoi, c'est là que vous polluez le plus. En parlant de la production, ce qui euh, pollue est simplement dû au fait qu'on change les équipements. Ça peut être un simple nano music player ce que vous avez dans la poche, ça peut être une station de gaming pour vous la péter sur le net, une station de travail, une console de jeu, ça peut être n'importe quoi, une télévision, un écran plasma, ce que vous voulez, un écran LCD, OLED, dernière génération, whatever. Euh, mais à travers les années, on ne peut pas dire vraiment qu'on ait fait des progrès en termes de durabilité. Euh, on a fait des progrès dans, dans le manufacturing, c'est vrai, mais du coup vous allez me dire d'où vient le problème C'est quoi, quoi le problème Comment ça se fait que, à travers le temps, on a diminué la durée de vie moyenne d'un ordinateur, qui fait la même chose qu'il fait aujourd'hui à son époque par rapport à son époque rapportée Vous voyez, on n'a pas plus ni moins. Mais là, vous commencez à voir venir peut-être un peu des mots comme l'obsolescence programmée. Voilà. Alors ça, c'est un slide un peu plus technique. Euh... Vous savez, ces, ces répertoires de packages qu'on a utilisés, qu'on entend pioche 10%, mais qui en viennent chercher plein, plein, plein autour qui servent à rien, mais ça, on appelle ça la graisse logicielle. La graisse logicielle, c'est des trucs qu'on met dans les softs qui sont plus ou moins utiles, qui sont intégrés avec. Mais qui ne sont pas forcément super utilisés. Donc ça, ça vient de la manière dont on conçoit le logiciel et dont on les implémente aujourd'hui. En fait, on se focus que sur les, sur les nouveautés, on ne regarde jamais ce qui a été fait avant. Euh, sous prétexte que ça marche, c'est forcément pas un problème. Or, c'est un problème justement parce que ça génère beaucoup d'inutilité les fichiers importés, les bibliothèques, les classes, le code mort, le code commenté, la surcharge dans les ressources, l'overhead, les fuites de mémoire, les fuites CPU, etc. En gros, dès la conception, il faut que ça soit absolument important d'être écologique et économique à la fois. C'est pas seulement une question pour les développeurs ni pour les architectes logiciels, c'est une ça vient essentiellement de la personne qui est, qui paye pour que l'application soit là, celle qui a le portefeuille justement est la première responsable pour dire je veux pas défoncer la planète. Les vrais responsables ce sont ceux-là, ce sont les personnes qui derrière vont payer et ordonner les chantiers. Et derrière, évidemment, il y a la mise en place. Donc, les gens en général sont mandatés, sont délégués pour superviser la production logicielle, mais ils sont très rarement intéressés par ce qu'elle fait. J'ai eu des gens dans mon boulot qui m'ont dit, littéralement, qu'ils se foutaient de ce qu'on produisait. J'ai eu quelqu'un, un, un client, qui m'a dit, tant que, que c'est en ligne au mois de septembre, j'ai ma paye avec un bonus à la fin de l'année, le reste, je m'en fous. Sur un projet qui valait à peu près 10 fois son salaire annuel. Euh, J'ai eu des gens qui nous ont demandé de bosser un an sur un projet, et à la fin d'un an complet, l'intégralité du projet a été jetée à la poubelle. Voilà. Et tout le monde était content que ça soit le cas. Voilà ce que nous, on sommes. On est euh, des enfants riches euh, qui jettent des crises au hasard à travers différentes couches de management et des appels téléphoniques à la direction. Euh, parce que personne ne regarde vraiment ce qu'on fait, personne ne s'intéresse à ce qu'on fait, les gens font juste commander en disant c'est bon le produit là, ça me suffit, merci. Donc en gros, on a tellement fortement décorrélé les besoins de l'exploitation, les besoins du développement et le développement de l'utilité et l'utilité des, des buts réels, communs, qu'aujourd'hui, on se retrouve à avoir une industrie qui n'est pas du tout en phase avec ce qu'elle peut générer comme pollution. Et bien entendu... Pour, pour ne pas en rajouter une couche. Euh, la cybersécurité aussi a un coût et ne fait pas exception à tout ça. Euh, par exemple, en 2017, le, le ransomware WannaCry qui était sorti, qui est très connu pour les gens qui se rappellent, a tapé sur des centaines de milliers de machines dans le monde et des organisations à travers à peu près 150 pays. Quoi. Ces attaques n'ont pas seulement, enfin pas vraiment ciblé l'infrastructure énergétique. Par contre, il y a des sociétés productrices d'énergie qui ont été atteintes. Il y a 20 000... Euh on va dire, stations de pétrole en Chine qui ont été offline, qui ont été coupées à cause de ce, cette cyberattaque. Ce qui nous amène à la dernière partie aujourd'hui, et euh, probablement la plus intéressante, qui euh, en fait désigne euh, ce qui s'appelle dans le monde du digital, mais pas que, ça, ça vaut pour d'autres euh, secteurs, l'effet rebond. Je vais citer un papier de Cédric Gossard de 2, janvier 2016. Écoutez un peu, vous allez voir, c'est rigolo. Entre 1982 et 2012, on parle de France, hein, il est français. Pendant que l'intensité finale de l'énergie finale, donc l'énergie, je vous rappelle qu'on a récupéré au moment où on l'utilise, hein, pas l'énergie primaire dans l'environnement, a décru d'un tiers, la consommation d'énergie finale s'est accrue de 15% en passant de 134 à 154 millions de tonnes équivalent de pétrole. C'est une manière de, de millions de tonnes équivalent de pétrole de pas dire joules ou watts, D'accord, c'est une autre énergie qui convertit directement. Le secteur du transport a aussi été témoin, été victime d'importants... Euh, victime était, a été plutôt... Pardon. A été sujet à d'importants gains en efficacité énergétique. Par exemple, la consommation en carburant d'une voiture moyenne, de moyenne gamme, d'envergure moyenne, est descendue de 8,3 à 6,7 litres au 100 entre 1990 et 2012. Par contre, les émissions en plus, on, enfin, on, par contre, on rajoute en plus les émissions de gaz à effet de serre d'une voiture neuve sont aussi tombées de 175 à, 125, à 124 grammes de CO2 émis par kilomètre, ce qui est pas mal. Mais dans la même période, la, la durée de vie moyenne d'une voiture est restée stable à à peu près euh, 13 000 km par an, jusqu'à multiplier le fait au moment où la voiture ne tient plus. D'accord donc en gros, le, le kilométrage moyen est resté à 13 000 km par an. Ces résultats devraient avoir conduit à des économies d'énergie pour l'économie française au niveau des véhicules. Et là, on parle uniquement, uniquement des voitures. Mais en fait, c'est l'opposé exact qui s'est produit. Puisque la consommation d'énergie finale a été diminuée, les véhicules coûtaient moins cher, et en vrai, le transport routier est passé, au sens large, de 32 à 36 millions de tonnes équivalent de pétrole et donc à augmenter ses émissions de CO2 de 10 Ça veut dire que malgré les améliorations énergétiques qu'on a produites, la consommation globale a augmenté et la pollution a augmenté, notamment à cause du nombre de voitures qui est passé de 24 à 32 millions, prouvant par cette simple métrique un effet rebond, c'est-à-dire que quand quelque chose devient plus accessible, devient simplement existant et utilisable par des personnes, elle ne mesure pas l'importance de ce qu'elles utilisent, elles l'utilisent. Donc en gros, quand quelque chose devient à votre portée, vous pouvez y avoir accès, vous l'utilisez à fond les ballons. Ce problème-là se retrouve dans la digitalisation et s'applique à, à peu près n'importe quoi. Une fois qu'on va à la vitesse d'un ordinateur, c'est-à-dire des milliers de fois plus vite qu'un être humain, on a tendance à vouloir l'utiliser plus facilement, le surutiliser. Mais c'est pas seulement notre faute, c'est aussi euh, piloté par des stratégies marketing. La plupart des, des, des sociétés, par exemple, euh, du numérique, vendent de, des données contre de la publicité au, au, au très haut niveau. Hein. Les, les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, et les BATX en Chine, euh, Baidu, Alibaba, Tencent et Xiaomi. Euh, essentiellement, on échange de services gratuits. Et la donnée vient de ces services gratuits. Vous savez, le vieil adage dit euh, en ligne, si quelque chose est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Qu'est-ce qui fait que la qualité de la publicité sur Facebook Ad Center, sur Google Ads, est aussi bonne que ça ou meilleure que sur bien d'autres services ben, Plus d'utilisation ramène plus de données. Vous avez déjà remarqué comment vous êtes incité maintenant à produire plus de contenu, produire plus de posts, de vidéos, que les assistants, l'aide à l'intérieur de ces vous incitent à le faire plus souvent, à mettre des planifications, à créer plus de contenu, plus souvent, à commencer à planifier vos posts, vos sessions de live stream, etc. C'est ce que vous demande Twitch, c'est ce que vous demande Facebook, c'est ce que vous demande tout le monde. Comment vous faites pour générer de l'engagement aujourd'hui L'engagement, ça veut dire n'importe quelle activité qui va en votre sens, hein, des likes, des pouces vers le haut, des souscriptions, des commentaires, des votes, etc. Tout simplement en publiant plus et plus et plus et encore plus, jusqu'à un point où 90% du contenu généré par les utilisateurs et utilisatrices n'est jamais vu. Les vidéos streaming, les photos sauvegardées en ligne, etc. Y compris ce qui a été publié, ça tombe dans l'oubli. Aujourd'hui, bon nombre de gens nettoient régulièrement leur profil Instagram, leur profil Facebook et enlèvent les vieux posts parce qu'ils préfèrent euh, les virer, parce que non pas parce que c'est des soucis écologiques, hein, c'est simplement parce qu'ils jugent que c'est des trucs trop vieux, que c'est pas la même époque, qu'ils n'étaient pas les mêmes personnes, et que ça entache leur image. Donc en gros, aujourd'hui, il faut être plus récent et être dans l'actualité et donner signe de vie régulièrement. Et bien tout ça, c'est utile. Ça contient de la donnée. Donc. Vous êtes encouragé à surutiliser ces services, à chatter, à envoyer des messages privés, à poster du contenu, à faire des réponses rapides, des réponses globales, des commentaires, le plus possible de choses. Quand on va sur Facebook aujourd'hui, sur, sur Twitter, partout, etc., il y a plein de sondages qui sont faits où les gens disent, par exemple, prouve-moi que tu es né à telle époque sans le dire avec une image ou avec un truc. Quand on te dit quel a été le premier pays où tu as pris l'avion, etc., tout le monde répond en disant, tiens, ça, ça, ça suscite en moi l'idée de répondre, de rappeler une histoire, et donc je vais, je, je vais répondre. Je vais dire, je, dis, tiens, je vais répondre. Ça, ça me fait plaisir. On se rend pas compte que derrière il y a quelqu'un qui récupère toutes ces données et qui en fait de la donnée et qui en construit avec ça, qui rassemble tout ça. Donc, l'animation de contenu aujourd'hui est extrêmement délétère pour la planète et ça, ça fait mal à entendre. Donc, chaque petite chose que vous faites est anonymisée, anonymisée, je vais arriver à le dire, et analysée. Du coup, cette petite partie cachée. Est, euh, pas forcément visible mais euh, cette excroissance en fait de l'effet rebond est inconsciemment euh, boostée par vos capacités de, de partage en fait vous, vous êtes déjà demandé euh, pourquoi toutes ces plateformes de création de contenu avaient commencé à payer les créateurs de contenu depuis quelques années vous pensez vraiment que les milliards qu'elles mettent chaque année pour que ces personnes euh, soient récompensées quand elles publient, c'est rien ou quoi que ce soit en comparaison de tout ce qu'elles récupèrent et des analyses qu'elles font à partir de cette donnée là. À votre avis, c'est qui qui a le meilleur turnover à la fin des années qui passent hein Et ben, ça c'est un putain de fléau et ça s'applique à tous nos devices, ça s'applique à tous nos comportements, à tous nos appareils. Par exemple, qu'est-ce qui fait la santé de Samsung, Apple, de Xiaomi ou de Oppo, les plus. Grandes sociétés qui vendent des devices mobiles aujourd'hui. Comment elles font de l'argent En vendant plus. Mais une fois que le marché est saturé et qu'on l'a vu, quasiment tout le monde a un smartphone. Comment on fait Eh bien, à ce moment-là, on peut faire un petit peu de nudging on peut vous inciter à changer votre téléphone. Par exemple, avec de l'obsolescence programmée, on peut euh, le rendre obsolète en arrêtant de, faire du, de fournir un support pour les systèmes d'exploitation en disant bah, Mais t'es trop tard, c'est trop vieux. On peut mettre du code caché. On peut faire des batteries qui, de manière prévue, vont s'abîmer au bout de 2-3 ans. Il faut, faut vous rappeler que c'est à peu près un tiers des, des raisons pour lesquelles les gens changent leur smartphone. Et ça monte. Hein. Donc, euh, voilà. Le, la, la raison d'après, c'est euh, la fin de la contractualisation avec le, le partenaire qui a dit euh, on vous paye votre smartphone si vous prenez un abonnement chez nous ou le forfait va coûter plus cher. Eh bien, tout ça vous incite à changer de produit, changer de forfait, changer de smartphone, etc. Et ensuite, donc, une fois que ça, ça commence à se mettre en branle et que les gens changent régulièrement d'appareil, de, de, eh bien, les applications dans les stores qui, elles, ne vendent pas des appareils vont commencer à monter leurs références et à aller vers des standards plus élevés en disant « l'appareil moyen est beaucoup plus récent ». Donc, plus, plus les gens qui ont des appareils euh, aujourd'hui les changent et prennent un nouveau smartphone, plus rapide, plus moderne, plus cool, etc., plus ceux qui sont derrière et qui n'en avaient pas besoin vont être obligés plus vite de devoir le changer. Ce qui est terrible, c'est-à-dire qu'en fait, on a un effet derrière qui est lui aussi à nouveau un rebond, c'est-à-dire qu'on va obliger les gens à encore changer aussi parce que vous avez changé. Et n'oubliez pas que pour certaines marques, la production et la, la, la distribution des smartphones, c'est 80% des émissions de carbone sur la vie complète d'un smartphone. Mais il y a des études qui disent qu'aujourd'hui, on continue de changer nos smartphones plus souvent qu'on change de t-shirt. Alors soyons honnêtes, c'est une partie également de ce pourquoi les appareils numériques évoluent. Ok, ils font de plus en plus de trucs et c'est normal, c'est une bonne chose. On récupère vraiment des bénéfices de tout ce qui est nouveau là-dessus. Mais le truc, c'est que on devrait avoir besoin que ces appareils changent et non pas qu'ils s'imposent comme un changement à nous. On ne devrait pas blâmer ces sociétés parce qu'elles produisent des smartphones. C'est pas ça le problème. Mais, pour, mais on devrait blâmer et collectivement le faire sur la manière dont on a accepté et construit la société moderne qui font que ce sont eux qui ont beaucoup de contrôle et qui incitent au changement. Je vais vous donner un autre exemple. Le covoiturage qui est non seulement une nouvelle tendance économique de l'économie collaborative et un exemple brillant pour réduire les émissions à effet de serre. C'est quelque chose que beaucoup de gens font aujourd'hui. C'est devenu un moyen commun de transport. Mais pour aider les gens à s'organiser, il y a des sociétés qui ont créé des sites web, des applications qui sont positionnées sur des solutions comme ça, de covoiturage, pour aider les gens à se rencontrer, comme Ola, euh, Uber, Lyft ou BlaBlaCar en Europe. Ces sociétés maintenant font des millions, pas dire des milliards, en agissant simplement comme un marketplace, une place de marché pour le transport. Mais elles ont des gens qui travaillent dessus. Elles ont des propriétaires, des actionnaires, etc. Ce qui nous amène à un problème. Comment est-ce qu'elles peuvent faire pour améliorer leurs revenus Elles peuvent faire la promotion du covoiturage pour améliorer la portée du marché global. Ce qui veut dire qu'elles euh, elles vont prendre de manière relative leur part de marché mais aussi prendre euh, la part absolue du nombre total de personnes intéressées par le covoiturage ou concernées. Mais ce n'est pas ce qu'elles font vraiment. En fait, ce qu'elles font vraiment, c'est se comporter comme des prédatrices par rapport aux autres compétiteurs du marché, du partage du marché avec lesquels elles sont, euh, dans cet espace global, dans ce marché global. Ce qui veut dire faire appel à du marketing, de la promotion, de la publicité. Tout ça nous amène à des quantités démentielles de pollution et d'énergie gaspillée. Le seul profit qu'elles font, qu'elles récupèrent pour ça, il est pour elles. Il n'est pas pour qui que ce soit d'autre. Et donc là, s'arrête la notion de profit et d'avantage de, de, écologique. Mais elle ne s'arrête pas là, bien entendu. Euh, pour améliorer encore leurs produits, qu'est-ce qu'elles peuvent faire de plus ben, Elles peuvent favoriser l'utilisation des voitures et l'encourager encore plus. C'est-à-dire qu'en fait, elles n'ont aucun intérêt au transport en commun. Donc il va falloir qu'elles se mettent en concurrence par rapport aux plus gros transports en commun qui sont, disons, le plus écologiques qu'elles. Donc récemment, on a commencé à voir apparaître, j'en ai vu apparaître, j'ai pas pris des photos parce que ça évite la diffamation, des promotions, en gros, sur ces sites-là, qui disent « on vous offre des bons d'achat en essence, des cartes cadeaux, etc. » Vous voyez où on va Pas du tout dans la bonne direction. Elles sont en train de tordre un truc écologique pour en faire un profit personnel, alors que leur business marchait très bien. Et qu'ils n'avaient pas besoin de ça. Bon, c'est pas le but de ce, de ce talk. Le but, c'est pas de les blâmer. Ce sont des sociétés comme les autres dans le monde. Et si on devait commencer à sélectivement fermer toutes les sociétés qui polluent sur la planète, on va peut-être pas commencer par les sociétés de covoiturage. On va les garder pour la fin quand même. Et on pourrait se poser aussi la question de ce qui arrive quand on commence à parler de responsabilité numérique. Est-ce que c'est mieux de commander chez Amazon ou localement Est-ce que c'est mieux pour l'activité locale Est-ce que c'est mieux pour la rétention de notre job parce que par exemple, si toutes les sociétés à notre échelle, dans notre ville, ferment, est-ce que notre ville ne va pas aussi fermer Les gens vont s'en aller ailleurs. Donc du coup, on va aussi perdre notre boulot, puisqu'il n'y aura plus assez de monde à recruter localement. Est-ce que c'est bon pour la planète Est-ce que c'est pire pour la planète Quel est le coût de choisir une livraison express Est-ce que c'est vraiment si grave que ça si on n'a pas tout de suite Est-ce que c'est mieux pour la planète si on utilise des points de retrait Ou est-ce qu'on fait tout livrer chez nous Lequel des deux est le plus économique Quel est l'impact de ne pas. Euh, être chez soi au moment des livraisons. Quel impact on a Est-ce qu'on devrait prendre un caissier ou une caissière humaine ou humain au supermarché ou à n'importe quel endroit ou prendre un self-checker donc des caisses automatiques C'est quoi les avantages et les inconvénients de chaque solution Qui travaille dans quel secteur des deux côtés Combien d'emplois ça crée, ça détruit des deux côtés vous vous souvenez de ces grandes études il y a quelques années sur comment les voitures euh, autopilotées, les voitures autonomes, devaient gérer les risques critiques. Est-ce qu'on écrase des animaux non humains ou des humains? Est-ce qu'on écrase les deux personnes âgées ou un enfant, ou deux enfants, ou une personne âgée, etc. Euh... Ça... Ça, ça. Ça a des conséquences. Euh... C'est justement, je, Daniel, je le dis parce que c'est beaucoup plus complexe que tu crois, en fait, de savoir lequel des deux rapporte plus de boulot entre les caissiers humains et les, caissiers automati les caisses automatiques. Euh, par exemple, est-ce qu'il faut acheter un livre numérique ou un livre en papier Lequel des deux pollue le moins, en final Pas facile. Est-ce qu'il faut de l'information qu'on récupère sur un média où on paye ou sur un média qui est gratuit, qui est donc financé par le placement de produits euh, publicitaires Quel est l'effet que vous avez en postant une image de vous euh, d'un moment joyeux où vous êtes content de la poster. Combien de temps avant que plus personne ne se souvienne de cette image Il ben, y a des solutions, il y a des organisations, des associations majeures comme Greenpeace par exemple, qui euh, ont commencé à faire des enquêtes et à produire des papiers en ce qui concerne les plus grandes sociétés du monde. Ils ont commencé à faire des, des rapports, justement en 2017, c'était vachement intéressant, et de, il y en a les dernières années qui ont, qui ont passé aussi, qui ont donné des évaluations sur les géants de l'industrie du numérique. Et vous aurez également toutes les sources à chaque fois à la fin de cette, cette talk. Euh, tout le monde, apparemment, n'est pas un gros, gros méchant, parce qu'en fait, elles dépendent beaucoup de l'opinion publique, et comme je me tue à l'expliquer, en fait, elles sont tellement grosses qu'elles ne peuvent plus prendre le moindre risque en termes d'image. Donc aujourd'hui, comme elles peuvent se payer à peu près ce qu'elles veulent, en fonction de leur taille, etc., euh, elles ont compris qu'en plus l'écologie est rimée avec économie. Et du coup, même s'il y a un peu de greenwashing aujourd'hui, elles vont toutes définitivement dans la bonne direction. Et bon nombre de, de sociétés et d'organisations indépendantes ont confirmé, et pas que Greenpeace, cette tendance générale. En fait, le, le, le géant des médias Sky, qui est un très très grand des géants médias qui possède plein plein de chaînes de télévision et de radio, etc., est devenu neutre au niveau carbone en 2006. Adobe, l'énorme producteur logiciel mondial, euh, est arrivé à le faire en 2013. Google l'a proclamé, ça a été plus ou moins validé en 2017, McKinsey et Apple en 2018. Alors, la prochaine fois que vous allez changer votre smartphone ou quoi que ce soit, pensez-y, il y a des choses à prendre en compte beaucoup beaucoup plus complexes que ceux qu'elles ont l'air d'être, notamment vos goûts personnels en couleur en forme ou le choix du système d'exploitation. Il y a des choses beaucoup plus subtiles à prendre en compte que ça. Et à propos de rien, euh, j'ai découvert il n'y a pas longtemps ce site Digital de l'EMAS qui vous donne en termes de responsabilité numérique d'expérience euh, vraiment extrême, c'est très extrême, mais c'est un bon réveil, c'est un site web assez immersif qui, a été pro qui est proposé par la, la Croix-Rouge et le, le mouvement Croix-Rouge, Croissant-Rouge. Euh, Jetez-y un oeil, c'est assez dingue quand même. Alors qu'est-ce que c'est que la responsabilité numérique au final avec tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui euh, c'est comme vous vous en doutez un spectre beaucoup plus large euh, de sujets, d'éléments de conscience et de faits que vous pouvez imaginer. Ça va en réalité bien plus loin et au-delà de la simple connaissance à propos de l'énergie des atomes et des molécules. C'est pas seulement votre équipement et vos appareils, c'est aussi comment vous les utilisez, on l'a vu, et pourquoi vous les utilisez. Pourquoi est-ce que j'ai fait cette conférence Je l'ai dit en introduction, je ne suis pas un spécialiste de quoi que ce soit, et euh, un petit peu du digital quand même, voilà. Et comme on l'a vu, la, 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 la politique n'est pas un monde à part, nous sommes la politique. Collectivement. Si vous enlevez les humains, personne ne s'intéresse à l'humanité. Personne. Donc, j'ai commençais à comprendre ça parce que j'ai compris que quelque chose allait mal et j'ai commencé à m'intéresser à ça parce que voilà. Et j'adore euh, discuter des faits de science et j'aime pas trop discuter de science et de faits scientifiques sans avoir un minimum de connaissances élémentaires. C'est pourquoi je fais aussi des conférences, des playlists YouTube, des posts sur les réseaux sociaux, etc. Je me suis challengé, pendant le Covid-19 euh, à discuter avec une personne qui n'était pas vraiment réticente. Euh, mais qui ne savait pas, qui disait juste je ne sais pas, et qui demandait être... Euh, ça, ça, comprendre un petit peu ce dont il se passait, et qui a entendu parler du vaccin. Un truc vraiment débile, simple à comprendre, mais qui demande un petit peu d'attention. On ne va pas se jeter là-dessus, ça prend quelques jours. Je ne vais pas dire publiquement que j'ai réussi à changer une partie de la face du monde, mais je peux vous dire que je lui ai donné toutes les clés pour comprendre ce dont il s'agissait, en étant absolument sûr en premier de prendre toutes les précautions d'usage pour lui dire voilà qui je suis, voilà qui je ne suis pas, et voilà où s'arrête ma connaissance, et pourquoi il ne faut surtout pas lui faire confiance sur ceci, 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 cela, et tous les points où je dis attention, c'est ce que j'ai compris, je peux avoir mal compris. Donc une fois les précautions d'usage prises, on est arrivé à quelque chose d'assez sérieux, et en 7 heures à peu près, j'ai compté, j'ai chronométré, la personne m'a dit qu'elle avait pris les rendez-vous pour aller se faire vacciner. En 2019, il y a une étude qui a montré que 69% des Français pensaient que l'énergie nucléaire contribuait aux gaz à effet de serre, aux émissions de gaz à effet de serre. Dont 86% des 18-24 ans. Alors en vrai, on l'a vu, l'énergie nucléaire n'est effectivement pas une énergie qui ne rejette pas de carbone. Elle est simplement bas carbone, pour pas dire très bas carbone. Donc, ils n'avaient pas complètement tort. Mais y a, parmi ces gens-là. Les réponses n'étaient pas du tout données dans ce sens-là. Elles étaient données en pensant que c'était la principale source de réchauffement de la planète. Donc, je ne peux pas vous dire avec quelle précision, mais je suis à peu près sûr que moi-même, à un moment de ma vie, quand j'avais 15, 16, 17 ans, j'avais une confusion et je crois que j'ai dû croire un peu la même chose aussi. J'ai commencé à croire un peu ce truc-là en pensant que ça polluait beaucoup l'atmosphère, les centrales et l'énergie nucléaire. Je suis, je suis pas sûr, mais je, je, je doute et je, je pense plutôt que j'étais convaincu de ça à un moment donné. Mais ça fait tellement longtemps, je m'en rappelle pas. Euh, je suis aussi convaincu que plus les gens savent des choses à propos de quelque chose qu'on appelle le réchauffement climatique, euh, plus ils seront à même de prendre des bonnes décisions. Mais aujourd'hui, euh, ils ne savent pas à quel point on est vraiment parti vers un danger énorme. Moi-même, pour être honnête, je le savais pas avant. Et. Je suis aussi convaincu que c'est mieux de parler à l'intelligence des gens que de parler à leur capacité à répéter la même chose euh, encore et encore. Donc, euh, ce, cette, cette conférence court, je ne vais pas vous dire qu'on va discuter tout, des diagnostics carbone, de comment agir, de refuser de contribuer à la pollution, etc., de changer votre vie. Je ne vais pas vous dire qu'il faut plus euh, voyager. Euh, comment vous pouvez affecter votre vie et celle des autres en ne mangeant plus de chair animale. Je ne vais pas vous dire euh, comment euh, les vélos sont des choses géniales pour la planète, comment les transports en commun devraient être gratuits, qu'il faut voter pour ça. Je ne vais pas vous dire qu'il faut installer des pompes à chaleur dans tous les bâtiments. Je ne vais pas vous dire et vous redire qu'il faut revoir les politiques d'isolation des bâtiments publics. Euh, les politiques publiques, pardon, des bâtiments. Euh, comment on devrait tous arrêter d'utiliser des motos Comment on devrait tous utiliser de l'énergie nucléaire en attendant mieux Des barrages, des maisons plus orientées vers le sud et vers là où la chaleur les optimise, parce que c'est beaucoup plus important qu'ils de mettent des panneaux solaires. Euh, je ne vais pas vous dire qu'il faudrait que là, tous les bâtiments aient une source d'approvisionnement énergétique euh, en neutralité totale et efficace. Euh, je ne vais pas vous dire euh, qu'il faut changer vos habitudes de tous les jours quand il s'agit de chauffer votre maison, qu'il faut baisser un peu le chauffage. Qu'il faut optimiser vos chemins motorisés, qu'il faut arrêter définitivement d'habiter loin de là où vous travaillez. Loin, ça veut dire plus de 5 minutes. Euh, Je ne vais pas vous dire qu'il faut euh, utiliser euh, le téléphone au lieu des messageries instantanées parce que le téléphone consomme 10 fois moins. Je ne vais pas vous dire qu'il faut euh, essayer de faire voter des limitations d'accroissement de population et des politiques de natalité. Je ne vais pas vous dire que le covoiturage et que la colocation de bâtiments, c'est génial. Je ne vais pas vous dire de conduire plus lentement, de ne pas faire d'enfants, de ne pas bo de boire l'eau du robinet, de ne pas acheter de l'eau dans les supermarchés, de changer vos lampes chez vous pour mettre des lampes à économie d'énergie, euh, de fermer les... Les voler quand vous dormez la nuit. Je ne vais pas vous donner tous ces milliers de, 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 de conseils-là parce que j'ai pas le temps et parce que c'est pas le but de la conférence. Donc j'ai choisi juste un truc, le digital. Et quand on parle de tout ça, de contraction, on dit tout à l'heure, le manque d'énergie, le manque de matériaux, va à l'encontre de la demande qui explose et ça crée de plus en plus de rebonds, de, 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 de problèmes euh, en cascade que vous pouvez imaginer. Parce que tous ces événements vont se passer à l'intérieur d'un cycle de vie d'un être humain. On ne va plus pouvoir attendre et compter sur la mort des êtres humains précédents, réactionnaires, réticents au changement et des générations qui ne voulaient pas changer. Entre autres choses, ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas juste dire OK, boomers, il faut maintenant faire avec les boomers ils n'auront pas le temps de mourir avant que la crise vraiment nous frappe encore plus. Donc, on va avoir de plus en plus de conflits. Parce que vont se retrouver à l'intérieur d'un même espace de vie, d'un même cycle très faible de temps, des personnes qui vont être vraiment à des niveaux d'information, à des niveaux de prise de conscience et des niveaux d'expérience de vie radicalement différentes. Et les gens vont être vraiment secoués et ils auront encore du pouvoir. Cette vidéo et cette conférence les enregistrera en 2021, parce que maintenant on est en 2021, et ça fait à peu près un an et neuf mois qu'on a la pandémie du Covid qui nous frappe d'à peu près partout. On a vu euh, beaucoup de moyens de gaspiller de l'énergie, des vies, et des conséquences indirectes à deux ou trois bandes en termes de coûts d'échecs numériques. Aujourd'hui, il y a deux directions qu'on peut prendre quand il s'agit d'avancer. Euh, D'un côté, il y a les fusions, enfin, on va faire enfin, fusionner un peu les robotiques, l'information, donc l'informatique évidemment, euh, les théories de l'information, les no-technologies, la génétique, etc. On va utiliser ce qu'on a découvert pour inventer, créer, fabriquer tout ça, soit dans une direction positive, soit dans une direction négative. Personnellement, c'est très personnel. Je ne vous encourage pas à penser comme moi, je vous dis juste que moi je pense. Je pense qu'aller du côté du négatif, ça conduit à ce que moi j'appelle une sérigation numérique. Et aller dans le sens positif, ça conduit à ce que j'appelle le transhumanisme. Je vous laisserai apprécier, critiquer, critiquer tous ces mots, vous en avez besoin, mais faites attention à ne pas les mélanger, à ne pas les confondre. Parce que très souvent, vous tombez sur des personnes qui, parfois à dessein, volontairement, vont pirater les termes pour changer leur signification. Donc d'un côté, on doit continuer la recherche, pousser la science et améliorer la technologie. Ce qu'on a aujourd'hui, euh, c'est c c euh, généré en passant en revue et en étant bénéficiaire de tout ce qui s'est passé dans les générations précédentes. C'est pour ça aujourd'hui qu'on peut se permettre de faire ça. D'un autre côté, il faut être sûr de ne pas créer des euh, habitudes polluantes dans la population pour qu'elles en bénéficient. Donc, quand il s'agit de, de progresser dans ces domaines, l'humanité est en permanence en train de marcher sur un filin très dangereux et de faire de l'équilibre dessus. Vous pouvez voir un parallèle dans, par exemple, euh, ce que disait Einstein dans sa phrase là, les avancées sur l'énergie atomique. C'est libre à vous de voir si vous voulez vous rappeler des bombardements de population, des tests de bombardement nucléaire, des tests nucléaires, ou si vous voulez vous rappeler euh, de cet accroissement temporaire euh, d'activité d'énergie sans pour autant détruire le climat. Et vous pouvez aussi vous rappeler que ça a été une arme de paix et pas une arme de guerre, puisque ça n'a jamais été utilisé en dehors de Hiroshima et Nagasaki. Euh, à des fins larges et des fins d'intimidation et que depuis tout le monde a peur de s'en servir parce qu'on sait très bien que c'est une arme qui, dont, dont les effets derrière sont tellement dévastateurs qu'on ne peut pas contrôler où ça va et ça peut arriver dans son propre pays donc voilà ce sont des considérations hors sujet tout ça mais c'est libre à vous de voir comment vous voyez le numérique aussi en fait il y a beaucoup beaucoup de raisons qui font qu'on pouvait aller vers euh, tout ça euh, en gros c'est énorme de se rendre compte, tout ce qu'on a achevé, tout ce qu'on a accompli ces dernières années. Euh, ça, ça donne le vertige de regarder, de prendre un peu de recul sur tout ce qu'on a créé. Il y a 30 ans, les gens nous prenaient pour des fous quand on disait qu'on communiquerait avec l'autre bout de la planète en moins d'une seconde et pas de la vidéo. Vraiment, les gens, vous pouvez retrouver il y a des écrits où des gens ont publié des écrits pour dire c'est complètement fou, vous racontez n'importe quoi. Il y a 9 ans, on a mis en évidence pour la première fois une fraction de seconde le boson scalaire qu'on appelle le boson de Higgs, la dernière particule manquante dans le modèle standard qui nous a permis de mieux comprendre pourquoi certaines particules avaient de la masse et d'autres n'en avaient pas. Il y a 4 ans, on a mis en évidence les ondes gravitationnelles en prouvant la fusion de deux trous noirs qui étaient tellement tellement loin dans la galaxie que c'est impossible d'y penser. Il y a 2 ans, on a modélisé pour la première fois une image d'un trou noir. On progresse à des vitesses incroyables. Mais il y a un problème. Au fur et à mesure qu'on avance, on a une responsabilité partagée de ne laisser personne sur le côté. Sans ça, c'est ce qu'on appelle, moi en tout cas, c'est ce que j'appelle la ségrégation numérique. Il n'y a pas seulement des problèmes physiques dans notre monde quand il s'agit du numérique, il y en a bien d'autres. Le numérique, c'est un support commun pour l'information, les services, pour le commerce, pour tout dans nos vies au quotidien, et on n'a pas vraiment d'idée de toutes les choses qu'on peut faire avec et de l'extension de notre monde à travers le monde du numérique et de tout ce à quoi ça va amener. Il y a plein de manières de représenter euh, euh, les choses, euh, de manière créée, et, et de les regarder s'épanouir, grandir, ramifier, et de les regarder à quel point elles peuvent euh, exploser à travers le monde, de, euh, de quelle manière elles peuvent être utilisées, et à quel point elles peuvent aller bien au-delà de ce pour quoi on les avait conçues à l'origine. L'énergie atomique en est un très bon exemple, Internet en est un autre exemple. Le philosophe Gunther Anders a dit... Un jour, et a parlé de ce qu'il appelait la honte Prométhéenne, en disant, à partir du mythe de Prométhée qui donc avait amené le feu aux hommes euh, dans la mythologie grecque, euh, et qui, en gros, ce, Prométhée, ça veut dire celui qui a pensé avant. Prométhée. C'est pour lui la honte ressentie par l'humiliation ressentie par euh, le fait de réaliser à quel point ce que vous avez créé va loin et vous dépasse totalement. Mais tout n'est pas brillant, surtout quand il s'agit d'être un espace de liberté et de contrôle à minima. Ceci est une image originale, vraiment, prise à l'origine d'Edwin Aldwin, Buzz Aldwin, prise en 1969 sur la surface du seul satellite de la Terre, la Lune. Il a fallu 400 000 employés de la NASA, 400 000, et des contractuels pour amener Neil Armstrong et Buzz Aldrin sur la Lune en 1969. Mais il a fallu une seule personne pour répandre l'idée que c'était complètement fabriqué, que c'était un mensonge en 1976. Il y a encore aujourd'hui une étude récente qui a été faite euh, pour dire que un Britannique sur six était d'accord avec la phrase suivante « Les atterrissages sur la Lune, les alunissages donc, ont été tournés sur Terre et sont faux ». 4% des gens pensent que euh, là-dedans cette théorie est euh, définitivement euh, fausse en fait. Euh, 12% pensaient que c'était probablement vrai et 9% des gens ont répondu qu'ils ne savaient pas. À propos de rien tant qu'on y est sur cette mission, regardez bien ça. Pour envoyer cet astronaute sur la Lune, il a fallu 70 kilooctets de data juste pour ça. Ils ont réussi à envoyer ce qui était énorme à l'époque. Hein, 70 kilo-octets de données pour envoyer un astronaute dans l'espace à cette époque-là. C'est à peine la taille d'un email aujourd'hui. Pensez à ça quand on pense d'optimisation en termes de données. Ça, c'est l'Italie en 2020. Il y a quelques semaines, euh, Francis Goncalves de Cardiff a perdu son frère, Shaul, qui avait 40 ans, son père, Basil, 73, sa mère, Charmaine, qui avait 65 ans, à cause du même virus, celui du Covid-19, le SRS COV2. Ils ont tous refusé de prendre leur vaccin après des, massives, des propagandes massives anti-vaccinales. Ils sont tous morts après avoir commencé à se sentir pas très bien le week-end du 10 juillet dernier, après avoir pris un repas ensemble. Sans savoir que ça serait potentiellement le dernier repas qu'ils avaient pris ensemble. Francis a, dit que, a déclaré que sa famille n'avait pas été vaccinée essentiellement parce qu'ils avaient été apeurés par euh, la désinformation euh, anti-vaccinale. Et, qu et que maintenant, lui, ce pauvre mec qui a perdu une bonne partie de sa famille, ses parents et son frère, est bombardé, littéralement bombardé, par des messages super mauvais, des menaces de mort, et qu'il a été accusé de mentir à propos de la mort de sa propre famille. Depuis, il y a des gens qui ont été visiter les tombes pour aller voir s'il y avait vraiment des gens dedans, et qui l'ont écrit pour le menacer s'il ne, ne diffusait pas publiquement les certificats de décès, parmi d'autres menaces. Ça, c'est ce qu'on crée collectivement quand la responsabilité numérique nous frappe, et qu'on ne fait pas attention à ce qu'on dit, à travers des, certes, conversations hors ligne, mais aussi à travers des conversations en ligne. Ça, c'est un site d'enfouissement en Inde. Avant d'être enterré, la majorité des gens qui sont indis euh, en Inde désirent être incinérés. Cette photo a été prise euh, l'année dernière, pendant la crise du Covid en 2020. Vous n'êtes peut-être pas familier avec cet endroit, mais les gens du reportage à côté disaient que d'habitude, il y avait 100 fois moins de tombes en même temps. On pouvait voir les fumées et les volutes de fumée liées à toute la crémation de tous les cadavres à des kilomètres à la ronde dans le ciel. Ça, c'est le Capitole, à Washington, aux États-Unis, le 6 janvier 2021. C'est l'endroit où a lieu normalement la réunion du Congrès des États-Unis et c'est la branche législative des États-Unis qui se retrouve là-bas, le gouvernement fédéral. Après avoir perdu l'élection, le président d'alors a encouragé les supporters, a incité les gens à apparaître et à venir envahir après des mois et des mois de fausses accusations, d'accusations de mensonges, de propagande, de fausses données, de hoax dans tous les sens, à l'intention de tout le monde, les commissions indépendantes, les personnalités du Congrès, les juges, tout le monde, à envahir donc le Capitole. Et devinez quoi, si vous l'avez raté en actualité, ils l'ont fait. Il y a cinq personnes qui sont mortes. Euh, juste avant, pendant ou juste après l'événement. Il y a beaucoup de gens qui ont été blessés, dont 138 officiers de police, et 4 qui se sont suicidés dans les jours qui ont suivi cet événement. Tout a été organisé grâce à des supports numériques, des groupes privés, de la messagerie chiffrée, etc. Tout ça, bien évidemment c'était public essentiellement, a été organisé en privé grâce à des supports numériques. Ça, si je devais zoomer dessus. Les sources sont à la fin des documents, toujours pareil. C'est ce qu'on appelle les, les papiers, qu'on appelle le Technical Report, la sixième version, émise par le Third Generation Partnership Project, le 3GPP, une organisation globale de télécommunications et qui définit des standards dans le monde de ce qu'on appelle la cinquième génération de réseaux de téléphonie mobile. En d'autres termes, ce que vous voyez là, c'est ce qu'on appelle la 5G. Ceci, c'est la 5G des documents techniques de référence sur comment faire en sorte que tout le monde sur Terre puisse interagir avec ces réseaux-là sans que ça soit un bordel global. Ce qu'on appelle des normes. C'est ce qui fait que par exemple avec de la 4G aujourd'hui, si votre téléphone est en 4G, vous allez en Chine, vous allez au Brésil, aux États-Unis, vous allez vous connecter à des réseaux. Pareil pour du Wi-Fi, ça fonctionnera correctement. Je voudrais bien que vous preniez un moment pour regarder ça. Pas en détail parce qu'il faut être un petit peu qualifié en termes d'ingénierie euh, réseau. Parce que je vous garantis qu'ils sont assez velus, à lire, il y a quand même quelques trucs dessus, je me suis musé à les survoler, mais voilà, c'est ok, c'est pas un problème, c'est le but. Ça, c'est la 5G. Ça, ce sont des séries de fioles qui contiennent des quelques doses, normalement 7 de mémoire, d'un vaccin qui s'appelle Okumir un vaccin ARN messager euh, contre la Covid-19, produit par une société qui s'appelle Pfizer. Ça contient 45 ml d'une solution liquide, qui est un mélange d'ingrédients. Le premier, évidemment, c'est une petite dose, hein, une dose donc 0,3 ml, ça contient 30 microgrammes d'ARN du Covid-19 embarqué, donc, euh, donc pas d'ARN pas directement du Covid-19, mais c'est lié au Covid-19, euh, qui est donc intégré dans des petites nanoparticules de liquide, de lipides, pardon, parce que c'est très fragile. C'est donc ce qu'on appelle une série de codons, séquences de nucléotides qui sont faites de nucléosides, donc de l'information organique et d'un phosphate. En d'autres termes, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de nous et de toute entité vivante sur la planète. Ou quasiment tout, on va dire, on va faire simple. Euh, ici, la séquence, c'est celle qu'on qu a mis dedans d'ARNm, c'est celle de la protéine Spike qui permet à l'organisme de reconnaître le virus qu'on appelle le srsov 2 qui est responsable de la pandémie du Covid-19. L'ARN messager ça a été découvert en 1961 par deux chercheurs, Jacob et Monod, à l'Institut Pasteur en France, qui ont eu tous les deux un prix Nobel pour ça. C'est exactement comme ça que les virus, en tout cas les virus à ARNm font depuis la nuit des temps, depuis l'aube de l'existence, depuis, la, le, depuis que la vie elle-même existe, même si les virus sont pas vivants. Euh, évidemment, les virus ont probablement existé sur Terre bien avant nous, homo sapiens. Ce qui fait qu'en fait, par exemple, je sais pas si on le savait, mais on est infecté par des milliers de virus par minute qui passent. Chaque fois qu'on qu respire, on peut inhaler, si on fait du sport, jusqu'à 2 millions de virus. C'est tout à fait normal. En utilisant la même euh, réplication technique que celle du virus, que celle de la vie humaine depuis des milliers et des milliers d'années. Uniquement avec une séquence partielle, on a réussi enfin à produire la méthode la plus sûre et la plus... Relaxante presque pour produire des vaccins qu'on n'avait jamais fait avant. Ça fait maintenant 4-5 ans qu'on l'a produit vraiment de manière industrielle. Il y a eu des vaccins anti euh, méningétiques qui ont été faits avant. Il y a eu pas mal de choses comme ça qui ont été produites. J'ai un doute sur l'adjectif méningétique, <laughs> anti méningique je sais plus comment on dit. Je crois que c'est méningique, Que les médecins me pardonnent. <laughs> Contre la méningite. Voilà. Contre une forme en tout cas virale de méningite. Euh, donc en gros. C'est quelque chose qu'on fait depuis des années ce truc-là, et qu'on sait simplement la manière de le produire en masse était tellement compliquée, tellement difficile à achever que jusque là on ne savait pas le faire. Et ça, ça balaye vraiment toutes nos anciennes méthodes un peu plus dégueulasses pour produire des vaccins qu'on avait avant. Ce truc-là est joint à tout un tas de petites choses à côté, vachement compliquées, donc par exemple des excipients, ALC030. Euh, 0315, ALC0159 et 10 Donc je vous encourage à aller sur Wikipédia, vous verrez, ce sont des lipides synthétiques qui sont utilisés pour encapsuler la pro et protéger le LRNM parce que c'est des molécules très instables qui s'abîment très très facilement jusqu'à ce qu'enfin elles atteignent le corps et qu'ils puissent être utilisées par euh, le corps humain qui est destiné pour ce vaccin. Et ensuite, quelques autres éléments dans les molécules pour euh, encourager, pour améliorer sa viabilité. Donc en gros, il y a des sucres, des sels, de l'eau, du potassium et d'autres trucs comme ça. Voilà. Donc, des choses qui sont en général faites pour la vie. Il n'y a absolument rien de sorcier là-dedans. Mais comme à chaque fois qu'on fait une découverte scientifique, un fait scientifique, il y a des gens qui deviennent instantanément réfractaires à l'idée et qui décident de, je ne sais pas pourquoi, agir contre quelque chose qui ne les concerne pas. Quelque chose qui n'est ne, qui, qui pas à leur portée. Que cette idée, qu'il soit concernée ou pas, d'ailleurs, ça peut être pour aujourd'hui un vaccin qui peut les concerner, mais ça peut être hier pour les micro-ondes, quand les fours micro-ondes ont été inventées, on dit que c'était la sorcellerie, ça peut être pour les premiers avions où on a dit qu'en fait il y avait la triche, euh, quand on a inventé le premier phonographe et qu'on a fait lire des, des rouleaux sur lesquels on enregistrait le son, les gens ouvraient les meubles, tapaient dedans, cherchaient, disaient « c'est une blague, il y a quelqu'un qui est en train de chanter à l'intérieur », enfin voilà, et il faut qu'on pense avec à ça. Pourquoi est-ce qu'on est sceptique Pourquoi est-ce qu'il fait qu'on devient réfractaire par principe Qu'est-ce qui fait qu'on décide d'être contre, être contre un truc qui nous passe vraiment au-dessus de la tête ben, Si vous vous souvenez par exemple des images de la 5G que j'ai mis juste avant, haut au hasard, il y a des gens qui vraiment ont répété, ont hurlé à des endroits qu'on pouvait mettre ces documents virtuels de normes administratives et de communication à l'intérieur de ces fioles des vaccins. Je fais volontairement une pause là-dessus pour qu'on se rende compte à quel point on a des personnes humaines, capables de faire des choses géniales, prendre une voiture, faire des courses, euh, euh, travailler, etc., qui arrivent à des conclusions comme celle-là. Ok À propos de la 5G, est -tu, voilà, de, ceci, c'est une antenne de communication, de, un relais. Euh, elle est faite d'environ une antenne de 230 mètres et un pylône haut de 40 mètres, qui sont essentiellement euh, dédiés à la télévision numérique. Le 11 janvier 2021, ceci et deux autres antennes à quelques kilomètres d'ici ont été, euh, ont été, ont été, ont été incendiées par des gens qui se revendiquent comme des activistes anti-5G, euh, qui ont nommé euh, leurs opérations à partir des bruits des vents et des chants des oiseaux. Le problème, c'est qu'en fait, à l'époque, aucune de ces antennes n'était utilisée pour transporter le réseau 5G. Elles étaient surtout, la plupart du temps, utilisées pour la télévision et la radio. Pendant quelques jours, il y a 1,5 million de personnes qui sont restées sans télé, sans radio. Beaucoup de ces gens habitent à la campagne, cette antenne est en pleine campagne au milieu d'une grande grande forêt, avec très peu de communication autour d'eux, avec très peu de contact avec le reste du monde et leurs proches, et il y a beaucoup de personnes âgées, par exemple, dedans, qui avaient la télévision comme seule compagnie. Et ça les a privés de télévision à ce moment-là, y compris des personnes malades, des personnes dans les hôpitaux, etc. Voilà. En fait, je connais cet endroit très très bien, parce qu'en fait, il est situé à 40 minutes juste au sud de l'appartement d'où je vous parle en ce moment quand je fais cette conférence. J'ai pas eu besoin d'aller très très loin pour trouver des conséquences d'action de personnes qui ne comprennent rien à ce qui se passe derrière. En revanche la 5G, la cinquième génération mobile, elle est tout à fait débattable en termes d'écologie et d'impact social. Elle est ambiguë parce qu'elle est à la fois faite pour améliorer les réseaux mobiles, pour le meilleur et pour le pire. Est-ce que c'est mieux si les vidéos, les chats vidéo euh, avec les familles, avec les gens qu'on aime bien, peuvent se faire plus facilement, plus rapidement, à des milliers de kilomètres et avec plus de monde relié au réseau Est-ce que c'est mieux si on peut euh, liker des postes de modèles en bikini ou qui posent en latex avec leur chien dix euh, fois par jour avec le même profil Est-ce que c'est mieux si on peut avoir des objets connectés comme des voitures, des véhicules de police, des frigos, des bouteilles de vin, c'est vrai, je le répète, ou des systèmes de chauffage est-ce que c'est mieux si on peut faire du streaming vidéo euh, de nous-mêmes qui ne font absolument rien de spécial, qui se baladent dans une rue et qui mettent une caméra devant nous pour, aller le, pour le plaisir d'aller partager ça avec des gens alors qu'on n'a absolument rien de spécial Est-ce que c'est mieux si un chirurgien peut euh, superviser une, une opération en urgence et assister à un collègue à partir d'une tablette en étant dans un train. Ça, c'est l'argument qui était souvent sorti par les gens qui sont euh, les, les, les personnes qui font déployer la 5G. Euh, Est-ce que c'est mieux si nos réseaux mobiles sont enfin désaturés et qu'on peut en profiter un peu plus et qu'on n'a pas des réseaux suroccupés Est-ce que c'est mieux si les fabricants ne vont pas massivement pousser les gens à changer de smartphone pour avoir de suite des smartphones compatibles 5G Bonne question tout ça. Moi, ce que je sais, c'est que si les gens n'ont pas l'information, qu'ils fabriquent, fabriquent la leur, ils imaginent une partie de ce qu'ils n'ont pas, ils la falsifient, volontairement ou pas, et les conséquences de cette imagination débordante peuvent être absolument dévastatrices pour le reste du monde, avec, et c'est là que c'est le paradoxe, les meilleures intentions. Et à propos du Covid-19, quand je disais, ça c'est pour le ce qui m'a, moi, attristé le plus. Non seulement il y a des personnes qui n'ont pas pu éviter le virus parce que les gens continuent à travailler, à vivre, etc. Mais ceux qui pouvaient, parfois, ont choisi de ne pas l'éviter. Ceux qui ont mélangé tellement de raconteurs et de, 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 de fake news, de hoax, etc. Je peux même pas vous dire tellement il y en a, ça, fait, ça donne le vertige. Ça, c'est tout ce qui nous reste de ces personnes-là. Des images de vieux comptes sur les médias sociaux envoyés par les familles aux médias. Des personnes qui vivaient probablement une vie peinard, euh, qui ont été capturées par le. Le, le tourbillon des news, des réactions à chaud, euh, de, du bordel complet de donner un micro à n'importe qui, surtout des personnes qui n'étaient absolument pas qualifiées pour parler et qui ont laissé penser comme ça que tout le monde devait avoir une opinion, devait avoir absolument une opinion, que c'était absolument obligatoire et que vous étiez idiot si vous n'avez pas d'opinion. En ça, collectivement, on a échoué. Ces personnes sont mortes. On les a considérées comme nos pères, PAIRS, comme nos égaux et ils sont toujours, quoi qu'il arrive, morts en ignorant les autres personnes ou le sens commun. Ça aussi, ça tombe sous la coupe complexe de la responsabilité numérique. Qu'est ce qui se serait passé si, par exemple, les médias qui sont les plus regardés avaient fait leur boulot correctement et avaient diffusé de la science et des connaissances, au lieu de créer des controverses gratuites, faciles pour faire de l'audience? Qu'est ce qui se serait passé si on avait pris un peu plus de temps et d'attention à donner, à diffuser des fondamentaux de science à ces personnes, au lieu d'organiser des plateaux avec des personnes qui disaient est-ce que les vaccins c'est bien, est-ce que les vaccins c'est pas bien, et de mettre 50% des gens à gauche et à droite, comme si les opinions dans les deux camps étaient de la même proportion. À quel moment est-ce qu'on a merdé Est-ce qu'on peut vraiment blâmer ces gens à quel, à quel point on peut pousser l'individualisme et ne jamais réaliser en fait que c'est un échec social et collectif que quand ces gens-là meurent, c'est une part de nous qui meurt aussi. Et moi, ce qui me donne les frissons, c'est que si ces personnes-là ne peuvent pas comprendre la RNM, les vaccins, ne peuvent pas comprendre en quoi les sociétés pharmaceutiques sont aussi tendues que les autres et ont une corde autour du cou dans de telles situations, persuadées qu'elles survivraient à tout, et il y a beaucoup à dire sur leur capacité à ne pas survivre à tout parce que certaines ont vraiment failli mettre la clé sous la porte pendant la, la crise là-dessus et pour des raisons bien précises. Qu'est-ce que ces gens-là voient? quand ils regardent la présentation du CERN qui annonce l'évidence la mise en évidence du boson de Higgs qu'est-ce que ces gens comprennent quand on leur montre le, le fusion par confinement inertiel qui est une des technologies aujourd'hui expérimentées pour l'énergie à fusion atomique qu'est-ce que ces personnes comprennent de l'effet relativistique de et du blue shift red shift de la longueur de la mesure de la longueur d'onde euh, des, des, des radiations qui ont créé, par exemple, à la modélisation de l'Aniakia que je vous ai montré au début de cette conférence que, quelle, quelle perception, quel rapport ces personnes ont par rapport aux faits scientifiques Comment vous pouvez arriver à de tels euh, résultats qui disent, par exemple, que. En regardant aux USA, sur à peu près euh, 36 000 sujets en 2016, euh, les gens ont trouvé qu'il bah, euh, y a à peu près 10% d'Américains qui pensaient que les chemtrails, donc cette espèce de, de complot comme quoi les, les, les traces laissées par la condensation des avions dans l'atmosphère seraient une diffusion chimique à des buts de contrôle de population, seraient vrai, complètement vrai, 20 à 30% plus ou moins vrai et ce. Sans, sans, sans impression qu'en fait euh, ils avaient vraiment un point de vue complètement partisan là-dessus en fait juste la, la théorie du complot sur les chemtrails les traces chimiques c'est un c'est un simplement en fait une confusion qui est basée sur deux observations la première c'est la trace de condensation laissée par les avions à haute altitude euh, et l'autre c'est l'aéronautique agricole qui vient répandre des fertilisants, des engrais, des pesticides et de l'eau au-dessus des plantes. Et il y a eu une confusion terrible entre les deux. Et c'est un truc qui a été complètement débunké et, et, et rationalisé depuis des années. Que les, les, les avions sont, sont absolument incapables de répandre des mélanges toxiques, que d'ailleurs en plus ne sont, qui ne sont jamais nommés par les personnes, à travers... Ces CONTrails, qui sont des condensation trails, qui euh, en plus vont... Alors là, bon, on trouve de tout. Euh, contrôle de la météo, euh, responsable du réchauffement climatique. Alors, Les avions sont responsables du changement climatique à leur part, mais pas à cause des traînées d'eau qu'il y a derrière. Ou jusqu'au contrôle des dépensées. Et en fait, euh, on se rend compte que Twitter est un, un très gros facteur d'aggravation pour ça. Alors, bon... Je pourrais vous donner des exemples pendant des heures, mais vous avez l'idée, je pense. Euh, la question, c'est comment est-ce que les gens ont su et comment est-ce qu'on a fait pour savoir Comment est-ce que l'information nous est arrivée Comment est-ce que l'information euh, nous a touché Est-ce qu'on n'a jamais fait un. un... preuve d'un biais de recherche Et notre responsabilité commune, c'est de faire en sorte que les gens se posent la question de la bonne manière, de la manière la plus sage. C'est comme ça qu'on construit la science. Et de cette manière-là, on ne va pas douter de tout. On ne doute pas de tout. C'est pas facile de comprendre ce qui est donné, connu ou non, ce que pouvait vérifier ou non. Et plus que ça, comment nous en tant qu'humanité, on a su quelque chose Comment est-ce qu'on a découvert quelque chose Comment est-ce que le monde euh, comment était le monde avant ou après avoir appris quelque chose Comment qu'est-ce qu'on connaissait du boson de Higgs avant 2018 Est-ce qu'on savait rien du tout, vraiment Réponse est non. Higgs et Brout et l'autre ont non, en formé leur papier en 1976 de mémoire. Euh, Est-ce on ne connaissait pas la forme de la planète Terre avant Galilée Est-ce qu'on n'a pas déjà prouvé largement il y a plus de 2500 ans que c'était le cas Est-ce qu'on ne savait rien à propos du pétrole avant que Drake commence à faire ses premiers euh, forages euh, pétroliers Est-ce qu'on ne savait vraiment rien de la Lune avant d'y envoyer des gens dessus est-ce qu'on a vraiment attendu euh, le moment où on a pu les observer, les planètes de notre système solaire, pour déterminer leur existence, leur taille, la rotation, etc. Est-ce qu'on ne connaissait vraiment rien de l'ADN avant 1962 La question, c'est comment est-ce qu'on a rationnellement appris des choses euh, à des époques où on n'avait rien à disposition pour le faire Et vous, ouais, vous, là, toi, maintenant, tout de suite, comment tu sais, comment vous savez, comment on sait qu'on a appris des choses dont on n'avait même pas idée est-ce que vous vous rappelez comment vous avez appris Comment vous avez acquis vos connaissances Et si oui, à quel moment vous avez acquis la certitude que vous saviez quelque chose Vous pouvez vous foutre de la gueule des gens qui pensent que la Terre est plate, ce qui est tentant, mais c'est pas du tout la bonne manière de faire les choses. Mais vous là, comment vous savez que la Terre est plate ou pas plate Comment vous savez que la Terre elle est vraiment ronde, et qu'elle est légèrement aplatie au niveau des deux pôles, et qu'elle fait 6400 km de rayon euh, euh, Comment vous avez su ça euh, comment... Vous savez, l'ADN, le, le, vous êtes au courant, les chromosomes, tout ça. Mais est-ce que vous pouvez expliquer comment ça fonctionne Vous savez expliquer qu'une cellule de votre pied n'est pas une cellule de votre œil. Mais comment vous pouvez expliquer que c'est le cas Comment vous savez que ça se passe comme ça Vous savez comment fonctionne un moteur de voiture, à peu près. Mais est-ce que vous pouvez expliquer d'où vient l'énergie qui est dans l'essence vous, vous, avez, vous avez jamais vu vos poumons. Mais vous savez que vous en avez deux. Comment vous, savez, vous pouvez prouver que vous avez deux poumons pour les gens qui en ont vraiment deux. Moi, en tant photographe, je peux vous dire un truc avec plein de modèles que je vous pensez vraiment que vous savez mieux que vous comment, à quoi vous ressemblez euh, et vous savez vraiment comment mieux vous prendre en photo que les autres. Mais je vous pose la question combien de fois vous vous êtes regardé vous-même à partir d'un point de vue extérieur Combien de fois vous avez vu votre dos en entier, depuis vos talons jusqu'à votre os pariétal Eh bien, ça c'est une problématique majeure ici en fait. On ne va pas entrer dedans trop, mais il faut comprendre comment on a construit une, une connaissance collective et comment on a été capable de prouver les choses. C'est pour ça qu'il existe des négationnistes, des conspirationnistes et des gens qui croient et qui a des croyances. Le mot croyance est très fort, il faut vraiment l'utiliser absolument jamais dans une vie. Quand vous manquez, de, points, quand, quand, quand vous manquez de, de quoi construire de rationalité, vous pouvez soit vous représenter votre manque de culture, soit le remplir avec tout ce qui vous intéresse ou qui vous passe par la tête. Et quand vous prenez le deuxième choix, vous commencez à chercher des choses qui vous plaisent au lieu de chercher des choses qui sont vraies. Mais il faut admettre que c'est dur. Il faut admettre que c'est dur de prouver, de démontrer tout à tout le monde. Parce que ça demande beaucoup de temps d'éducation, de transmission. Ça requiert évidemment un état d'esprit, ça requiert de la focalisation. Parce que les humains ne peuvent pas prendre tout leur temps à tout redémontrer pour tout le monde tout le temps. C'est beaucoup trop long. Pour ça, notre responsabilité collective, notre responsabilité aussi par le numérique, c'est de partager la connaissance, de donner des ressources et des sources adéquates aux gens, et parfois d'explorer le doute. Parce que le doute, c'est sain et naturel, mais on ne peut pas passer notre vie à douter de tout, surtout les millions de mécanismes passifs qu'on utilise tous les jours, qui ont été inventés et découverts bien avant qu'on naisse. On ne peut pas être un partisan de la Terre plate et utiliser un GPS. On ne peut pas vivre dans un monde où la diphtérie n'est plus du tout une menace pour l'humanité dans le pays dans lequel vous vivez et être contre les vaccins, surtout 180 années après qu'on les ait inventés. Mais oui, vous pouvez euh, comprendre complètement comment ils fonctionnent. Ça demanderait des connaissances élémentaires, euh, par exemple euh, de la théorie générale de la routine d'Einstein pour le GPS ou euh, de la faucité mémoire et de la réponse secondaire et des interleukines pour les vaccins, par exemple. Mais ça va prendre du temps et on ne peut pas enseigner ça à tout le monde. Et les études pour apprendre ça s'allonge, ça s'allonge, ça s'allonge. Ça Ce qui nous amène à un problème épistémique, c'est-à-dire lié à la connaissance. Comment on fournit l'accès et la connaissance à tout le monde Ça pourrait être une autre conférence entière sur... Euh, le, le, le mal paradoxal qui est en train de ségréguer, de, de séparer nos masses. J'aimerais vous parler encore une fois de, de, pendant des heures de la crise qu'on traverse et de comment euh, j'ai choisi d'essayer de rester essentiellement sur, des, sur le terrain de la physique aujourd'hui. Mais pour résumer en quelques mots, on a laissé pas mal de pays euh, s'adonner au libéralisme et détruire nos systèmes culturels et éducatifs. C'est pas à propos d'un pays en particulier, ça pourrait s'appliquer à beaucoup, beaucoup de pays et beaucoup, beaucoup de systèmes scolaires. En vrai, évidemment, je pourrais vous parler du système français, mais c'est une tendance générale. Ce qui veut dire, en tant que résultat, on ségrègue, on clive les masses, et on reproduit des classes sociales à partir de nos systèmes éducatifs. En vrai, de manière très simplifiée, ça veut dire qu'en fait, c'est aussi lié à notre intelligence, et notre intelligence, c'est liée aux génétiques. On a des expériences de vie, des constructions sociales plus ou moins justes, de l'injustice dans les structures, etc., qui vont submerger les personnes que nous sommes et qui vont aggraver les conséquences de cette destruction tacite. Alors je sais, on se dit où est-ce qu'on va, mais malheureusement, je n'ai pas, dévelop... pas le temps pour développer tout ça. D'un autre côté de ce paradoxe, euh, on doit réaliser que la connaissance humaine s'accroît incroyablement. Au, pro... Au début, on n'avait pas cette connaissance euh, pour, euh, pour aller à l'école. On n'avait même pas la connaissance de ce qu'on pouvait enseigner aux gens. La principale source de production de l'humanité, c'était l'humain lui-même. On n'avait pas le temps. On n'avait pas le temps de survivre à travers des actions sur l'intelligence. Et puis, euh, on ne pouvait pas vraiment aller à l'école très longtemps au début. Et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Je pouvais vous parler de ma grand-mère, qui était née en 1926 et qui m'a toujours dit qu'on l'a mis dans un champ. Euh, avec ses propres mains et des outils agricoles, euh, j'aurais aimé que vous voyiez ses, ses doigts à la fin de sa vie, et qui a été enlevé de l'école euh, à l'âge de 13 ans pour la foutre dans un champ, c'est ce qu'elle me disait littéralement. 13 ans, c'est pas vraiment vieux, hein. Deux générations plus tard, j'ai quitté, euh, moi, le système éducatif global après un master et six diplômes. Mon premier diplôme, le baccalauréat français, qui ne compte même plus comme un diplôme aujourd'hui, quand il s'agit de recruter. M'a été donné cinq ans après l'âge auquel ma grand-mère a arrêté l'école. J'ai fini l'université et mon école d'ingénieur 11 ans après son âge, quand elle, 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 a, elle a quitté le truc. C'est-à-dire, j'étais à plus du double. Ça, c'est le gap qu'il y a eu entre deux générations. Et il n'est pas encore suffisant pour couvrir toute la connaissance de mon secteur, loin de là. Donc à un moment donné de, de ce qui s'est passé dans le temps, on a été capable de générer des systèmes éducatifs pour que les personnes euh, puissent appréhender un peu ce qui se passait derrière. Donc euh, en gros, euh, on a été capable de comprendre la connaissance à propos de l'univers, modulo, le, 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 la connaissance consensuelle insuffisante, en disant, on appelle ça de la recherche ou un manque de connaissances, ou des connaissances au bord des connaissances humaines. Donc on vous donnait de quoi comprendre le monde. Et on vous donnait en plus, à travers un système éducatif, les outils pour qu'une personne moyenne puisse appréhender la vie après ça, en disant, on vous donne les clés, on vous laisse les clés de la vie derrière, en disant, il y a plein de portes, on ne sait pas encore ce qu'il y a derrière, mais vous avez les clés pour entrer dedans et pour comprendre les choses. Comme ça, dans les prochaines décennies, avant que vous mouriez, vous aurez quand même l'opportunité de comprendre ce qui se passe dans le monde, parce que nous-mêmes aujourd'hui, on ne peut pas vous l'enseigner, ça n'existe pas encore. Et ça, c'est très important. Dans le secteur du numérique, on connaît ça parce qu'on se fait donner en général des, des, des connaissances algorithmiques en programmation, euh, sur les objets, les bases de données, la modélisation, mais on n'apprend pas plus que trois ou cinq langages à hein, niveau débutant sur les 600 et quelques listés sur Wikipédia. Et comme vous savez, il euh, n'y a pas de honte à ça. On peut apprendre certaines choses et derrière, on apprend le reste derrière parce qu'on a les clés pour appréhender ça. Quand j'ai eu mon dernier diplôme, Docker n'existait même pas. L'orchestration de conteneurs n'existait même pas. Et le deep learning n'existait même pas non plus, ou en tout cas à des formes très primitives. Maintenant, je fais des conférences là-dessus. Ensuite est apparue une deuxième époque pour l'être humain. Alors, euh, celle où on disait, peu importe qui vous êtes, euh, vous pouvez comprendre le développement humain maintenant. Et ça, c'est quelque chose qui est déjà révolu. C'est-à-dire qu'en fait... À ce moment, on pouvait dire... Euh, on pouvait estimer dans le temps où est-ce qu'on était. Euh, je ne peux pas vous dire à quel moment ça a eu lieu. Je ne veux pas réveiller tous les réacts dans l'audience. Et les aficionados, les, les, les choses étaient mieux avant, le monde était mieux avant, c'était mieux avant. Mais il y a eu un moment, entre la Première et la Seconde Guerre mondiale, où on a transité vers ça. Et on a commencé à um, arrêter d'enseigner certaines langues, l'histoire, la géographie, les maths, la philosophie, la littérature, la biologie, euh à une intensité comme on le faisait avant, parce qu'on a commencé à devoir enseigner autre chose. Et puis plus assez de chacune, c'est-à-dire que le, le temps était toujours le même, même si les gens restaient plus longtemps à l'école, il y avait plus assez de temps pour tout apprendre dessus. Euh, pour moi, cette époque-là où on ne donnait plus que les clés, on n'expliquait plus aux gens, en fait, voilà tout ce qu'il y a à savoir dans le monde, mais voilà de quoi vous démerdez, comprendre un petit peu comment, les, comment fonctionnent les choses dans le monde, euh, on a commencé à enseigner l'électronique à l'école, la physique, la chimie, euh, l'informatique, l'ingénierie, l'économie aussi beaucoup, et c'est assez récent en fait, en fonction du pays dans lequel vous êtes et de son développement économique, c'est assez récent. À partir de ce point un peu flou dans le temps, quelque part à un moment donné, on n'est plus arrivé euh, à fournir aux gens la connaissance de l'univers parce que avoir la connaissance de chacun des domaines de l'univers, c'était avoir le cerveau d'Albert Einstein dans mille domaines différents. Donc, on a commencé à faire des sélections. Des spécialités et à se battre tous les ans dans les proportions de ce qui devait être enseigné, ce qui est un combat permanent pour, pour tout le corps enseignant, euh, pour dire qu'est-ce qui doit être primordial et qu'est-ce qui va primer. Et évidemment, tout prime, malheureusement. À partir de ce moment-là, on pouvait choisir les, les fondements, en disant ça c'est la connaissance générale, la connaissance civique, la capacité à communiquer et les bases de la science moderne. Et je pense que je suis à peu près encore partie de cette série de générations, je ne sais pas sûr moi-même d'en faire partie. Euh, et même peut-être pas dans les derniers, je pense qu'il y en a eu après moi encore, qu'il y a eu quelques années où ça s'est passé après comme ça. Et maintenant est arrivée une troisième ère, celle dans laquelle, à mon sens, à moi, on est aujourd'hui, celle qui est hautement débattable et critiquable, parce qu'évidemment, c'est quelque chose d'irrationnel et dur à prouver, donc euh, voilà, mais c'est un axe de réflexion que je donne, c'est pas une, un fait statistique évidemment. Euh, il faudrait débattre euh, de ça, parce qu'on n'a pas le temps, mais il faudrait en débattre. Cette ère-là a vu l'arrivée de beaucoup beaucoup d'outils. La facilité, les distractions, les opportunités, les objets, les sujets, les jeunes générations peuvent même plus prendre tout parce qu'elles commencent à rater l'essentiel. Et pour être honnête, aucun d'entre nous, je parle à tous les adultes dans la pièce ici, les boomers peuvent rester aussi, ne ferait mieux que les générations aujourd'hui. On ferait exactement la même chose. C'est pas une question de qui sont les gens, c'est une question de dans quelle époque ils vivent. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses à apprendre, il y a tellement de connaissances fondamentales, on est tellement challengé tous les jours, on est mis à l'épreuve, euh, que c'est vraiment devenu une épreuve d'avoir des connaissances fondamentales. Et aujourd'hui, pour l'instant, euh, les élèves à l'école euh, que moi je connais, ils reçoivent des, des, des concepts éducatifs incroyables. Euh, les personnes qui ont 20 ans de moins aujourd'hui entendent parler dans leur dernière année d'études, au même âge que moi, de physique quantique, de dualité, onde, particules et de transfert d'énergie. Moi, j'en ai pas entendu parler à l'époque. Et on faisait beaucoup, beaucoup de physique. Et on avait le même volume que. Donc, waouh On fait tellement de choses au XXIe siècle que la jeunesse doit apprendre que voilà. Et pendant que les boomers sont occupés à leur dire qu'ils ne savent rien, pas la moitié de ce que eux savaient à l'époque. Euh, voilà, rappelons au passage que les boomers en général, on leur donne des tests basiques. Hein, de ces étudiants, euh, avant d'avoir 18 ans, on leur propose de passer les tests, ils échouent lamentablement. Donc, au niveau des connaissances, il ferait de la fermer souvent. Mais voilà, donc, faut réaliser à quel point c'est devenu difficile aujourd'hui d'avoir la connaissance et d'avoir les clés pour s'en sortir de tout. Et euh, ça s'accumule tous les ans, tous les ans, tous les ans, par-dessus nos têtes. On a de moins en moins de temps et d'attention pour les fondamentaux. Et c'est pas notre faute. C'est qu'on porte moins d'attention qu'avant, à la langue, à l'écriture, à la lecture, à s'exprimer correctement, et d'ici et, et peu, maintenant, à comprendre la science aussi. Ce qui fait qu'en fait, on ne s'exprime plus correctement, on ne communique plus correctement, on ne sait plus correctement, et à partir de ce moment-là, on peut faire lire n'importe quoi, n'importe qui, n'importe quand, et on peut faire répandre des choses qui n'ont aucun fondement rationnel et qui peuvent paraître parfaitement rationnelles aux gens. C'est-à-dire qu'on recrée de la croyance, là où on aurait dû avoir du savoir. Et ça... C'est une bombe à retardement euh, au niveau de l'ignorance. Comment est-ce que les gens peuvent, euh, peuvent savoir que la Terre est parfaitement ronde, qu'elle fait 40 000, km euh, de circonférence, et comment ils peuvent savoir comment on a appris ça comment, on fait, euh, comment les gens peuvent ne pas écrire que les vaccins contiennent de la 5G quand ils n'ont jamais appris euh, quoi que ce soit à propos des transmissions d'ondes, euh, de l'électromagnétisme ou des, des, des cellules mais euh, des, des cellules lymphocytes à mémoire quoi. Euh, Comment est-ce qu'ils ne peuvent pas écrire que la majorité des gens qui meurent à un moment où ils sont pleinement vaccinés euh, sont partiellement ou complètement vaccinés euh, comme une conclusion entre ces deux assertions sans faire de, de lien, de causalité, de conclusion entre les tailles de population en disant qu'aujourd'hui... Euh, on fait un, un total. Moi, j'ai vu ça il y a quelques semaines avec des statistiques sur l'Angleterre où des gens ont dit il euh, y a énormément de personnes qui étaient vaccinées qui euh, mouraient euh, quand même du Covid. Et en regardant l'étude, je dis mais tu te rends compte que la, la population étudiée dans les deux cas c'est de fois 1 à 25. Et les gens ne comprenaient pas, ils n'arrivaient pas à lire, à, à comprendre un, une simple assertion mathématique, un tableau statistique avec des, des nombres à lire. Rien d'autre que ça, ils ne savaient plus lire des nombres et comprendre les proportions. La logique qui allait derrière leur était complètement étrangère. Euh, C'est pas parce que vous voyez plus de sang sur les routes à côté des accidents que les voitures saignent. C'est pas parce que vous voyez plus de feuilles qui tombent quand il y a du vent que le vent est fait à partir de feuilles. Ou si vous préférez, comme on a vu en 2020. C'est pas parce qu'il y a une toute petite étude publiée qui dit que 23% des gens qui fumaient avaient des chances de survivre en plus du Covid que la nicotine devenait un pro, un, une, une molécule capable de, de, de prévenir de la mort du Covid-19. Sans pas empêcher les gens de se précipiter chez les buralistes pour aller acheter des tonnes de tabac. Et ceci, c'est le moment où on se situe aujourd'hui. C'est le moment où on réalise que c'est impossible pour nous de continuer dans cette direction. Ça m'a pris 4 jours pour comprendre les bases et, euh, et, et de réaliser à quel point l'immense majorité de ce que j'ai compris en quatre jours, et, enfin de, de, de tout ce qu'il y avait derrière à comprendre, était quelque chose de totalement inconnu pour moi. À propos de l'ARNM, de la réplication virale, du facteur R0, du cov 2 de comment il attaque le corps humain, de la protéine Spike, de l'histoire des coronavidae, de la proximité phylogénétique avec le SRS-COV, le RATG-13, et comment les vaccins modernes fonctionnent, les principes de vaccination, euh, des fondements philosophiques à propos de la liberté, euh, et comment faire face à une situation où tu ne sais absolument rien, John Snow, euh, mais que tu veux toujours ne pas être ignorant. Et moi, je me suis dit, en quelques jours, j'ai réussi à réaliser à quel point j'étais incompétent sur ce domaine-là. Et à quel point je pouvais, à coup de Google et de recherches effrénées, comprendre le minimum vital et dire je pense que je peux expliquer à peu près comment ça se passe. Et avoir en face de moi des virologues et des médecins qui diraient pas mal, bien joué, c'est pas tout bon, mais on va, on va corriger dans l'ensemble, c'est bon. C'est vraiment très difficile. Moi, ça m'a pris 6 euh, heures pour arriver à, à expliquer à une personne tout ça. Donc... Voilà, si elle m'écoute, je lui envoie les meilleurs bisous et les meilleurs souhaits. J'espère qu'elle va bien. C'est quelque chose qui vraiment est, demande une patience complexe, en enfin fait, vra vraiment longue. C'est hors de portée d'une personne normale. Et ça, c'est partie de notre problème aussi. La connaissance, c'est gratuite, euh, mais elle ne vient pas gratuitement. Elle consomme du temps, d'énergie de la part de personnes. C'est une succession de mille années d'expérimentation, de recherche, d'apprentissage et de transmission. Ça prend du temps d'investir, du temps de la passion, etc. Dans un monde au bord d'un effondrement, euh, ça fait longtemps qu'on a commencé à expliquer à peu près tout. Il y a tout exprimé uniquement par le prisme de l'argent. Et quand vous monétisez tout, que vous voyez tout par le prisme de l'argent, tout a un coût et tout finit par être vu par le prisme du coût, malgré les apparences. La bonne nouvelle, c'est que la connaissance a un prix, mais elle peut se répliquer. Et après, vous avez deux personnes qui ont de la connaissance et ça a coûté quasiment rien. L'information, c'est quelque chose que vous pouvez répliquer gratuitement, avoir des copies individuelles, et on a besoin de payer pour ça. Comme tous les gens euh, qui, par exemple, aujourd'hui, regardent cette conférence. Mais il y a toujours un effet pervers. Le doute, lui, il a un coût. Les gens qui sont en doute sont en pause, ils n'avancent pas. Et à nouveau, c'est OK de douter c'est totalement normal. Mais si tout le monde doute à la fois, le monde s'arrête. Pendant qu'on reste dans le doute, le monde autour de nous continue de tourner et d'avancer. Par, par exemple, vous pouvez être en sur le déni complet du changement climatique en tant qu'individu. Ça a été démontré sur un consensus scientifique depuis des décennies maintenant. Et pendant que vous continuez d'être ici à douter, le monde, lui, continue de mourir. C'est pareil pour chaque décision euh, et chaque doute exprimé. Je pourrais vous dire. Très souvent, le doute, euh, c'est la fierté et la version d'un assumé de l'ignorance. Parce que dire je ne sais pas quand vous ne savez pas, et parce que répondre à des simples questions quand la problématique est complexe euh, n'amène personne nulle part. Quand attendre des réponses très simples quand le, le, la vraie réponse elle est complexe, ça ne mène à rien. Et à la fin, on se retrouve avec des directions confuses et on se retrouve avec euh, un système où on va sur penser, on va surréfléchir de la part de non-spécialistes. Parce que l'ignorance d'une personne n'est pas l'ignorance du monde, et parce que ce qu'on appelle le doute n'est pas le doute d'un spécialiste. Parce que quand vous trouvez enfin un spécialiste en doute ou qui est dans la négation, ne veut pas dire que vous avez trouvé une preuve de la négation. Je suis moi-même un, un ingénieur du logiciel, et je peux vous dire, j'en ai vu des gens mauvais, avec beaucoup de diplômes avec beaucoup d'expérience. Moi, j'ai cinq diplômes post-baccalauréat et je peux vous dire, j'en ai écrit de la merde de logiciels à travers ma vie. J'en ai fait des erreurs. <laughs> j'ai été mauvais et incompétent et je le suis probablement pas encore au maximum euh, de mes compétences. Loin de là. Je peux vous dire, il n'y a aucune garantie nulle part que quelqu'un qui a obtenu un diplôme qui est certifié ne soit vraiment bon et ne devienne pas complètement débile et fous un jour ou l'autre. Dans le sens non validiste du terme. Dans le sens vraiment, quelqu'un qui devienne déconnecté. Mais pas malade, déconnecté. Si vous voulez faire une comparaison, il y a une que je fais de temps en temps. Si vous admettez qu'un doctorat prend 8 à 13 ans euh, pour obtenir son, dans son champ de recherche, euh, et que une personne peut péter un câble et se mettre avec ce doctorat, et tout ça, une personne diplômée de 8 à 13 ans d'études peut tuer quelqu'un de sang-froid, et que vous l'admettez, et vous dites juste. Euh, bah euh, voilà, la personne a pété un câble euh, et elle peut perdre euh, son esprit. Il n'y a aucun lien. Elle avait un doctorat, elle avait euh, un gros diplôme, elle était chirurgien, ce que vous voulez. Elle était, euh, elle était, euh, était euh, spécialiste en physique nucléaire, ce que vous voulez. Cette personne peut péter un câble et tuer quelqu'un d'autre. Et ça, ça vous, ça vous paraît totalement euh, possible. Possible. On ne dit pas que c'est normal, on ne dit pas que c'est bien, on dit que c'est possible. Ben à ce moment-là, vous devez admettre qu'il est aussi possible, même si vous êtes dans la physique quantique, les génétique, euh, médecin généraliste ou spécialiste en, artific en, en, en intelligence artificielle, en, en grec ancien, en pédologie, l'étude des roches, ou ce que vous voulez, vous pouvez admettre que cette personne, au bout d'un moment, finisse par lâcher complètement prise et se retrouve à raconter n'importe quoi, y compris dans son propre domaine d'exercice, de profession. Ce qui nous amène à un concept assez étrange j'en avais parlé au début, euh, dans les années 90, jusqu'à 90, en fait, jusqu'à ce que l'Internet à large bande, on va dire, à large pénétration, arrive pour les masses, la communication était souvent officielle, publique, etc. Et euh, de temps en temps, pub public plus privé. Puis en fait, elle a commencé progressivement à se construire autour de etc. Et euh, aujourd'hui, c'est tellement... Euh, courant de devenir un producteur de contenu à travers les médias comme Twitch, un Twitcher, un YouTuber, que c'est devenu un métier. On en a fait un métier, ça existe et maintenant on en trouve des milliers sur le net. C'est devenu un rêve pour beaucoup d'adolescents. Le problème c'est que les réseaux sociaux et les réseaux en général en fait ont changé euh, sans que personne n'ait jamais prévu ça. Ils ont tous euh, pour la première fois... Euh, ils ont été pour la première fois des médias. Et ils ont connecté des gens. Et ça fonctionne. Donc, on est dans un paradigme dans lequel on peut aller n'importe où sur Terre et garder des liens forts avec d'autres personnes. Ce n'était pas le cas il y a 30 ans. On doit être conscient de ce genre de changement de paradigme. En fait. Aujourd'hui, on peut être un média récurrent et on a changé le rapport qu'on a à l'information. Et parfois, pendant qu'on baigne dans cette information, on peut tomber sur des comportements non rationnels, euh, qui ne sont pas conscients de tout ce qu'il y a, etc., de la connaissance, et qui peuvent parfois s'exprimer très fortement qui peuvent parler très fort, voire hurler. Et personne n'est jamais arrêté pour dire des choses fausses très très fort. Personne ne va venir vous, vous poursuivre. Juste parce que, comme pour le, le changement climatique, vous, vous ne faites du mal à personne en disant que c'est faux et que ça n'existe pas. Euh, quand vous dites que vous parlez des chemtrails, que vous parlez de l'autisme dans les vaccins, quand vous niez l'Holocauste, quand vous inventez des sociétés secrètes comme le Nouvel Ordre mondial, les Illuminati, les reptiliens ou que ce que sais-je. Vous faites du mal à tout le monde en même temps. Parce que pour certains d'entre eux, on a depuis des siècles maintenant toutes les données, les réseaux, les appareils, tout ce qu'il faut, les recherches, tout maintenant nous prouve que on sait, au bout d'un moment, on sait, on a les preuves et c'est acté. Et ça, c'est très 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 compliqué à retenir. Et ça fait qu'au bout d'un moment, en fait, beaucoup de monde peut être parlé à parler en dehors de son domaine de compétences. Et c'est ce que je vous ai expliqué au début. En fait, euh, voilà, je, 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 je... on peut croiser des personnes qui n'ont pas de compétences particulières. Et euh, je peux vous dire que moi-même, qui travaille par exemple dans le développement logiciel depuis 15 ans, je suis comme Jon Snow, je ne sais rien. Voilà, je travaille à fond dessus et je ne sais rien. Voilà. Et. En gros, ça consiste à dire, euh, si vous regardez ça, ça consiste à, à établir ce, cette espèce de graphe pour dire en gros, voilà, comment on fait pour savoir ce qu'on ne sait pas, combien de temps ça prend pour savoir ce qu'on ne sait pas et qu'est-ce que ça représente. Et c'est là que c'est très difficile. Pour commencer à savoir ce qu'on ne sait pas, il faut savoir un minimum. Et jusqu'où ça peut aller, le fait de ne pas savoir. Ça, c'est un truc qui m'a choqué moi pendant la pandémie du Covid-19. Rappelez-vous qu'à ce moment-là, hein, euh, personne autour du monde euh, n'était très à l'aise, tout le monde était très tendu. Et on a commencé à voir des comportements très irrationnels émerger. Comme euh, on avait déjà certains comportements irrationnels avant, mais ceux-là vraiment ont explosé à ce moment-là. À ce moment-là, euh, l'Organisation des Nations Unies n'a qu'une seule recommandation pour soigner la COVID-19, un antipérétique contre la fièvre et l'antalgique contre la douleur, comme le paracétamol, euh, qu'on appelle aussi un acétaminophène, Et puis sont venus les corticostéroïdes en septembre 2020 et les bloqueurs euh, de récepteurs d'interleukine 6 en juillet 2021. ok Donc en gros, il n'y avait que ça. Et là, les médias, je vous l'ai dit, ont commencé à avoir une approche euh, scientifique en ligne et sur leurs médias à eux, comme on le fait pour les idées. On sait évidemment que euh, c'est bien entendu la même chose, hein. et que confronter des idées, en général, on va inviter des pour, des contre, dans les mêmes proportions. Et on fait parfois euh, des interviews seules avec des gens. Mais ça, quand on le fait au niveau de la connaissance scientifique et de la recherche, c'est un danger absolu. Quand vous invitez des gens qui sont dans des proportions euh, contradictoires euh, similaires, vous, venez, vous devenez dangereux vous-même, à tel point qu'à un moment donné, euh, les, 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 les shows TV euh, qu'il y a dessus, les émissions, les diffusions, la radio, le papier, YouTube, etc., euh, sont devenus des pseudo-débats avec des sujets très critiques et des personnes qui voulaient absolument, devaient avoir un avis, devaient en parler sans que même les meilleurs spécialistes du monde aient le, mo le même avis de ce qu'on avait dessus. Il n'y avait absolument rien. Et du coup, la science a été un peu obscurcie. On a vu beaucoup plus de scientifiques, donc des personnalités, jusqu'à leur créer un nom pour dire ça là, ils vont faire de l'audience parce qu'elles sont connues, parce que les personnalités pas connues, ça fait chier. Donc, on a commencé à inviter beaucoup les mêmes et celles qui gueulent le plus fort. Et du coup, la connaissance a disparu et sont apparus les petits noms en bas de l'écran pour dire on a invité machin ou machine. Et à un moment donné, dans cette pandémie, dans un pays, la France, chez moi par exemple, des gens. Qui étaient euh, isolés de force chez eux, donc en confinement obligatoire, avec le moral en déclin et une privation forte au niveau de leur liberté habituelle de vie. Un sondage public est apparu et a été mené sur les gens. Vous me lisez bien, un sondage. Et dans ce sondage, on a demandé aux gens à propos d'un sujet de recherche où aucun des spécialistes, vraiment pour lequel aucun des spécialistes n'avait la réponse, on a demandé des gens leurs opinions sur des, des, des sujets mais extrêmement complexes. On leur a demandé leurs opinions sur une molécule utilisée dans des médicaments. On leur a demandé euh, quel type d'accréditation euh, les docteurs, les médecins devraient avoir pour le prescrire. Ce qu'ils ignoraient avant d'ailleurs au passage. Et euh, on leur a demandé leurs opinions sur le financement public de différents types de centres de recherche sur la médecine. C'est-à-dire qu'on a mis au même plan des start-up à la con qui ne risquent rien, des centres de recherche publics qui sont là depuis des siècles, des laboratoires privés qui sont plus ou moins grands, et euh, on a demandé aux gens si en plus les médicaments étaient bons ou ce médicament-là en particulier était bon ou pas. Le plus drôle en fait, c'est que ce sondage a été fait par des médias privés euh, possédés par des gens très riches qui produisent du contenu qui est essentiellement. Contre l'économie publique. En un seul mot, lol. Je pense que c'est à ce moment-là que j'ai commencé à me bourrer la gueule pendant le confinement. Et ceci est une tentative de résumer l'anthropologie la, numérique. Je vais essayer de faire ça court deux secondes. Je vais reprendre de l'eau parce que j'ai besoin de boire. Donc, je reprends. Alors, ça, euh, c'est une tentative euh, que je vais avoir d'expliquer euh, comment l'anthropologie et la sociologie numérique fonctionnent. On a une tendance naturelle à assembler, à se rassembler en fait avec des gens qui sont comme nous, qui nous ressemblent qui viennent du même endroit, qui partagent des idées présentes, passées, etc., qui partagent des choses, qui nous ressemblent, qui sont comme nous, qui pensent avec nous et qui sont d'accord avec nous. On appelle ça l'homophilie. L'homophilie amène à des gens à se rassembler dans des couches sociales, des couleurs, des, des, des paramétrages ethniques, politiques, des différents critères d'opinion sociale, de richesse, de santé, etc. Ça crée des groupes. Et des relations. Ces relations génèrent un espèce de comportement magnétique à l'intérieur de la population. Les gens, ensuite, les individus, se rassemblent dans des lieux où ils se sentent en sécurité, où ils se sentent bien parce qu'ils sont similaires. À l'intérieur de ces places virtuelles ou physiques, les frontières sont non poreuses. C'est-à-dire que ce qui est exprimé à l'intérieur rebondit dans tous les sens et tout le monde commence à devenir la source d'information de tout le monde. Mais de quelqu'un d'autre dans cette sphère, dans une sorte de système circulaire. On appelle ça des chambres d'écho, euh, indépendamment du type de média, que ce soit un, un média diffusé, un média social, partagé, etc. Ces chambres d'écho enlèvent la contradiction et l'opposition. Elles donnent du coup l'impression que soudainement beaucoup de gens sont d'accord avec nous, sont mis d'accord avec nous. Et ça crée un biais cognitif intense qu'on appelle le biais de faux consensus. Et ça, c'est extrêmement euh, problématique. Ensuite, on rajoute par-dessus la partie numérique, parce que ça, ça existait déjà avant. Quand on construit des plateformes sociales, il a été de manière euh, sûre et certaine depuis longtemps euh, constaté empiriquement qu'on confrontait les gens que confronter les gens, euh, pardon, euh, les uns avec les autres au hasard n'est pas une bonne idée. Les gens ne sont pas capables de communiquer et d'avoir des, des des raisons individuelles. Ils ont des raisons individuelles de défendre des mondes différents qui sont chacun les leurs, leurs mondes respectifs. Ce qui amène à des des impossibilités euh, de d'accord. Il n'est pas possible pour ces personnes de s'accorder. Donc toutes les applications, les sites web ont commencé à amplifier ça. Pourquoi Parce qu'à la fin euh, les personnes qui avaient des opinions sur plutôt pas seulement les messages qu'on leur avait renvoyés mais aussi le média qui les supportait. En gros, quand vous commencez à vous engueuler avec des gens sur Facebook, vous commencez à avoir une moins bonne image de Facebook. En considérant que ces plateformes dépendent des personnes qui les utilisent, on a vu tout à l'heure, et que leur business model, c'est que les gens doivent l'utiliser à fond, elles ont commencé à analyser les activités des gens et ont déterminé en analysant tout ça qu'on pouvait offrir de la sérendipité. C'est-à-dire qu'on pouvait offrir le fait de trouver des choses sans les chercher. On pouvait filtrer les contenus similaires et les verrouiller dans leurs bulles. À propos des bulles, un autre problème sur les médias sociaux, il y a trop de choses qui sont produites aujourd'hui, à nouveau, parce que les plateformes promeuvent le tout-le-temps, 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 poste tout-le-temps ou meurt. C'est un business model aujourd'hui. Jusqu'à un point où les marques payent des personnes pour capturer l'attention des utilisateurs, des followers, de ce que vous voulez, toute la journée. Du coup, il y a des réseaux qui ne sont pas capables, plus capables depuis longtemps, de montrer tout le contenu nouveau aux utilisateurs. Tout simplement parce qu'il y en a beaucoup trop. Et parce que le temps d'utilisation et de focalisation, d'attention, est en train de chuter. Donc, il y a un besoin de filtrer et de trier ce qui va le plus intéresser les utilisateurs et utilisatrices d'un réseau. Ce qui les condamne à ne jamais voir le reste, définitivement. Et ça, ça s'appelle le filter bubbling en anglais, la bulle de filtrage. Qui est à la fois un procédé mécanique normal pour construire une application. En gros, quand vous êtes abonné à 100 personnes qui publient 10 trucs et que vous avez le temps d'en voir 10 au total, lesquels on prend, euh, si, vous, si vous préférez de plus un, plus, manière plus schématique. Et euh, tout ça nous amène à penser euh, qu'il y a plein de choses dans un monde qui vont dans notre direction. Jusqu'à un point où, quand elles ne le vont pas dans notre direction, on arrive à les interpréter de travers. Je vous parlais tout à l'heure des statistiques sur les hôpitaux anglais. On les rejette parce qu'elles ne vont pas dans un sens qui nous convient. Et même si on arrive à se persuader, au bout d'un moment, à se faire persuader que c'est le cas, on va les rejeter, on va passer à autre chose, on va les oublier. Donc, on va commencer à interférer avec ce genre de recherche, de, de biais de recherche, comme par exemple, on va chercher pourquoi est-ce que X tue plein de gens au lieu de dire pourquoi est-ce que X est dangereux. Comme dans un débat physique avec les personnes, vous pouvez interpeller quelqu'un, dire tu es d'accord avec moi, plutôt que de dire qu'est-ce que tu en penses. Ça, c'est ce qu'on appelle un biais de confirmation. Et quand vous mélangez tout ça, avec la vitesse à laquelle les nouveaux sujets sont débattus, créés, discutés tous les jours, par dessus nos têtes, à notre niveau misérable ou en dessous, peu importe. Quand vous réalisez que le monde est en train de s'accélérer au niveau de son rythme de vie, au niveau de son rythme d'avancement, la, la respiration du monde accélère, et que ces, ces avancements, ces phénomènes, cette analyse euh, elle-même accélère et que vous n'arrêtez pas d'avoir sans arrêt de nouvelles polémiques, de nouveaux sujets tous les jours, tous les jours, des nouvelles choses et qui parfois vous biaisent. On vous oblige à réfléchir sur des sujets malsains. On vous oblige dès le début à mal poser les questions parfois. Par exemple, on ne vous dit pas qu'est-ce qui cause les migrations de population dans le monde. On l'a vu par exemple aujourd'hui essentiellement. On vous dit faut-il foutre dehors tous les gens qui ne sont pas comme vous ça, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets. Et à un moment donné, vous n'avez plus le temps. Et les sujets ne durent que quelques jours, voire quelques heures, ce qui est encore du pain béni pour les médias sociaux. Et du coup, tout ça, ça crée ce qu'on appelle euh, le, le, cette accélération de, de sujets qui arrive de plus en plus. Et l'ensemble de ce que je vous ai mis là, ça crée ce qu'on appelle le renfort populaire, euh, le communal reinforcement en anglais, qui veut dire simplement qu'on répète les choses à nouveau, encore et encore, contre toute forme de rationaliser. C'est ce qu'on appelle aussi l'effet du piano. Sauf que l'effet du piano, ça n'existe pas. C'est juste un anagramme de mon nom de famille, qui s'appelle Pinot, mais le reste existe. Vous voyez à quelle vitesse et à quel point dans n'importe quel secteur on peut créer de la force d'information à, à laquelle si vous ne dites rien, les gens peuvent finir par croire à n'importe quoi. Qui aurait été vérifié ça si j'avais rien dit Ça peut aller très vite. Une grande expérience que vous connaissez, euh, si, si, je je, je laisserai lire en détail hein, dans, dans les sources à la fin. Euh, Wikipédia est très très bon là-dessus pour expliquer comment ça s'est passé. C'est l'expérience de conformité de Solomon H. C'est une des expériences de psychologie les plus connues pour euh, la psychologie de masse. En gros, pour faire simple, dans un petit groupe de gens qu'on a présenté euh, dans une pièce en disant euh, ces gens sont tirés au hasard, on va, la, on va, on va faire répondre euh, à des questions basiques vraiment toutes bêtes, hein, comme celle sur cette image-là, euh, quelle barre à droite est de la même longueur que la barre à gauche, euh, on va assembler plein de gens et on va prendre soi-disant des gens au hasard dans la population, sauf qu'en fait... On va pas du tout les prendre au hasard. On va prendre une seule personne au hasard et les autres seront au courant depuis le début de ce que c'est que l'expérience. Et on va lui dire au fur et à mesure on va prendre des questions de ce type-là, plus ou moins faciles à répondre. Et les autres sont des acteurs payés pour aller donner les mauvaises réponses dans des proportions qui vont changer avec le temps. Donc tout le monde sait exactement ce qu'il doit répondre, ce qu'il et elle doit répondre à chaque fois. On filme et on regarde les réactions des gens. Et tous les tests qui étaient proposés étaient relativement simples. Fallait pas avoir un un doctorat dans un métier particulier pour comprendre ce qu'il y avait à répondre. Et oui, c'était des questions qui pouvaient semer le doute, mais qui n'étaient pas très dures. Et les résultats sont, mais, époustouflants. Vraiment, à couper le souffle, à, à, un, à un moment donné, au bout d'un moment, à partir d'un certain point, n'importe quel sujet va se ranger derrière la majorité, même si la majorité a mal répondu et que la personne a bien répondu, et ce, de plus en plus. Cette expérimentation sur le conformisme social est absolument incroyable et montre à quel point on peut se manipuler les uns les autres dans les deux sens, dans le bon et dans le mauvais, même parfois sans le vouloir réellement. Puisqu'effectivement, les expériences ont été refaites après en rajoutant d'autres personnes, d'autres réponses, en changeant les proportions d'acteurs payés et de personnalités tirées au sort, et on arrive toujours plus ou moins au même résultat. Comme pour n'importe quel Expérimentation. Je vous suggère de lire le protocole en entier des expérimentations parce que cette expérience a été refaite des centaines de fois depuis et elle est aussi régulièrement refaite euh, avec des changements. Enfin voilà, voir si il y a des changements dans la population qui regarde. Ok. Et un dernier topic avant de tout résumer. Je devais euh, parler de ça parce que c'est important aussi. Hmm. C'est très important de parler de tout ça. Sans parler d'énergie, de matériaux, d'éthique, de psychologie, etc. Sans parler un peu d'économie. Ceci, je vous promets, c'est le plus long slide de cette présentation. C'est pour ça que j'ai choisi de mettre tout sur un seul slide. Donc du coup, je vais être super feignasse, je vais juste le lire avec vous. Aujourd'hui, on a toujours, et je vous jure que c'est vrai, aucune explication physiologique, psychologique, sur pourquoi le corps humain, et ben, c'est pas le seul d'ailleurs au passage, ne cesse jamais de devenir de plus en plus obèse au fur et à mesure qu'on lui fournit des nutriments, alors qu'il en a assez pour subvenir à sa journée et à plusieurs journées d'avance. Il en va de même pour le capital, la propriété et l'argent. On ne sait pas expliquer aujourd'hui pourquoi, alors que quelqu'un comme Jeff Bezos ou Elon Musk, qu il voulait, qui possède mais des milliers de fois plus que tout ce dont il aurait besoin pour vivre la plus riche de toutes les vies riches du monde, c'est-à-dire que à part vouloir acheter des pays, il ne peuvent pas faire grand-chose, et là, acheter des pays, ça ne l'intéresse pas. Euh, il a le pouvoir qu'il veut, il a le pognon qu'il veut, et avec ça, il continue quand même, alors qu'il est au bout qu'il pourrait s'arrêter et donner à manger à 20 générations d'enfants après lui, il continue quand même son activité et il continue de gagner de l'argent. Et ce n'est pas pour ce, le plaisir de sa société. Pourquoi est-ce qu'il fait ça Il y a des tonnes de gens qui se penchent là-dessus, parce que c'est un danger pour la planète, donc ça vaut le coup de l'étudier, et personne n'a trouvé la réponse. Personne n'a jamais approuvé le fait que les personnes démarraient des initiatives individuellement des associations, des collectifs, des sociétés, des États, etc. Personne. Absolument personne. Ça a été des initiatives individuelles, où les gens se sont rangés derrière plus ou moins, mais on n'a jamais pris le temps de dire. Le fait que, par exemple, aujourd'hui, moi, je fasse cette vidéo, que je l'enregistre et que je la diffuse, personne ne m'a demandé mon avis. J'ai pas demandé l'avis à qui que ce soit. Il n'y a pas de validation collective. Il y a plein de choses qu'on fait dans le monde qui peuvent générer de la pollution, notamment, mais personne ne va jamais les valider. Personne. On s'occupe au mieux des extrêmes une fois que les extrêmes sont arrivés. Personne n'a jamais approuvé votre business. Tous les gens qui ont créé une société aujourd'hui, qui sont vivants, sont incapables de dire... Qui a vraiment approuvé collectivement leur truc À quel moment ils ont été voir une population, une foule de gens pour dire je rassemble 30, 40, 50, 100 personnes, 1000 personnes, un échantillon représentatif, et je vais dire est-ce que vous êtes d'accord pour que je crée ma société Personne ne fait jamais ça. Jamais, jamais, jamais. Et vous n'avez jamais eu à justifier ce que vous apportez au monde d'aujourd'hui. Jamais. Vous pouvez être une société parasitaire qui fait de la merde, pour ne pas dire autre chose, toute la journée. Tant qu'elle est dans les clous de la légalité, personne ne viendra jamais vous demander le but de ce que vous faites là. Je ne parle même pas de but éthique, je parle de simple but sociétal. Personne. Vous existez tout simplement et vous avez un cadre légal minimal qui vous demande de remplir trois paplards et d'éviter de déborder le reste du temps. C'est tout. Personne. Ensuite, vous rajoutez le fait qu'on a pensé que de toute façon, ça se régulariserait ça tout seul par les lois du marché, en disant. La seule, seule prisme, la seule métrique par laquelle on va vous voir ce que vous faites et votre, votre travail, en fait, votre production, c'est de dire si jamais vous faites quelque chose de mauvais, le marché vous condamnera. Par contre, on peut avoir un truc super malsain, super toxique. Si quelqu'un est là pour l'acheter, c'est que c'est justifié. Donc c'est le marché qui vous justifie votre propre activité au milieu de la jungle économique justifie à elle-même, tautologiquement, sa propre existence. Une fois démarré, vous, et seulement vous, avez une permission de propriété souveraine, déterminée par les lois de votre État et par celles de bon nombre d'États du monde, et qui est une majorité, euh, qui représente ce fonctionnement, une majorité absolue du territoire terrestre aujourd'hui. Où que vous alliez, vous serez concerné par ça. Du coup, les employés et votre force de travail sont séparés. Des moyens de production, c'est-à-dire que les personnes qui travaillent pour vous et avec vous ne, ne possèdent rien et ne sont pas avec vous. Aussi, les travailleurs, du coup, se retrouvent, s'ils, séparés des résultats de la production, c'est-à-dire que le surplus généré ne va pas automatiquement, proportionnellement, rejaillir sur eux à échelle individuelle par rapport à ce qu'ils ont fait. Ce qui veut dire que seulement, et, ça, et seulement, hein, le, le, le seul but. Euh, et la finalité, finalement, l'utilité de ces structures, celles qui produisent, est la seule et unique finalité lucrative, ce qu'on appelle l'accumulation de capital. Ceci, c'est la base de ce qu'on appelle l'économie libérale par le biais de la liberté d'entreprendre. C'est uniquement basé sur une croissance infinie, déconnectée, autocratique. Qui est un concept qui est très 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 largement enseigné dans toutes les grandes et petites écoles privées, publiques d'économie et de stratégie du monde. Et vous venez de voir que cette infinité, elle est plus que largement questionnable pour ne pas dire qu'avec ce qu'on vient de voir, elle n'existe pas. Le cadre global dans lequel vous allez euh, exercer cette croissance est supposé non défini. Et il reste non défini. en supposant que la somme de toutes les initiatives de tout le monde va grossir, quoi qu'il arrive, et qu'au pire il ne reste plus qu'une personne qui sature un marché, et qu'elle n'a qu'à se débrouiller pour que le marché grossisse. Ces trois faits, ces trois phrases, ces trois prédicats, une fois qu'on les a accumulés et mis bout à bout, la séparation de la propriété, la génération, la... la, la, la pardon, la... la de la, de la valeur accumulée, et de la valeur générée par euh, la structure productive, l'entrepreneuriat le, et le but lucratif de cet sont euh, les fondements de ce qu'un mec, il y a quelques années, un économiste, euh, philosophe et penseur, Karl Marx, avait défini comme étant le capitalisme, une, mécanique, une extension mécanique du libéralisme. Le capitalisme, aujourd'hui, c'est la doctrine vraiment majoritaire à travers laquelle le monde. Euh, se projette et avance ou pas. Et à ce jour, c'est ce qui domine depuis, alors pour certains le Moyen-Âge, pour d'autres le XVIIIe siècle, pour d'autres la dernière révolution industrielle. Euh, ça dépend de ce qu'on range derrière le terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'économie de marché est totalement dépendante de l'énergie et des matériaux du marché, mais, 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 mais jusqu'au bout, pour l'instant, reste complètement irrégulée dans son but et sa justification. C'est-à-dire qu'elle se fiche royalement de savoir ce qu'il y a sur la planète. Tout ça signifie que, concomitamment, notre civilisation est basée sur des promesses non soutenables et non structurelles à long terme. La manière qu'on a eue d'exploiter et de construire nos ressources et son allocation de la répartition des ressources, amplifie les dégâts qui sont causés par ce que je vous ai montré depuis le début sur l'état physique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en gros, euh, en, étant, en ayant cette vision euh, du monde, sans avoir besoin de justification, euh, on arrivera probablement jusqu'au bout à se regarder les uns et les autres dans le blanc de l'œil sans être capable de se remettre en question. Pourquoi Parce que ça concerne tout le monde à la fois et que c'est structurel. Et quau au-delà de la mécanique physique, la manière dont on a choisi de faire fonctionner entre nous tout ça, nos textes, nos lois, notre économie, notre politique, est lié, est très 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 étroitement lié, euh, intriqué, de sorte à ce que dépatouiller tout ça pour en faire sortir un élément, l'extraire et tenter de l'améliorer, va relever de l'acrobatie de haut vol. Alors du coup, vous allez me dire, waouh, est-ce que en opposition de tout ça on devrait commencer à tous euh, passer en revue nos pères et autoriser et valider ce que tout le monde fait et veut voir. Mais ben, croyez-le ou pas, ce que j'essaie de montrer à travers cette conférence et à ce moment-là, c'est que tôt ou tard, ça va plus être une question d'opinion. Ça va devenir obligatoire. Quand vous n'aurez plus les moyens de produire, euh, qu'il n'y aura plus assez de moyens pour produire tout pour tout le monde, il va falloir choisir communément. Ce qu'on veut faire ensemble. Alors, euh, si ce que vous appelez euh, le communisme euh, en conjonction avec une, une foule globale, un contrôle ultra -démocrati démocratique euh, et, et pour la première fois dans l'histoire, une direction euh, décidée, validée ensemble. Ben, bah, est-ce que c'est ça qu'on a Est-ce que c'est ça qu'on cherche euh, Ça, ça sera uniquement quelque chose que le futur pourra nous dire. En ce qui me concerne, parce que je pense que quelques-uns d'entre vous voudraient une réponse, je pense que forcer les choses ne peut pas arriver, que c'est absolument impossible, qu'on ne sait pas se forcer à cause des structures existantes, et qu'on ne pourrait que créer plus de panique qu'on en a aujourd'hui, et que jusqu'au bout, euh, l'esprit de jungle triomphera sur le reste. Mais que quand on va commencer... Tôt ou tard, on va devoir passer par des régulations et des contraintes. Quand vous commencez à avoir plus de régulations et de contraintes que de liberté, vous avez un environnement plus coercitif. C'est la moindre des choses. La mise en commun des moyens de production n'est pas l'interdiction de faire certaines choses qui vous plaisent et qui ne sont pas dangereuses pour la planète. Par contre, comme on l'a vu, il y a beaucoup, 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 beaucoup de choses qu'on fait. Qui nous ont l'air inoffensives et qui ne sont absolument pas inoffensives. Je veux dire, j'ai pris l'avion comme tout le monde, c'est cool de prendre l'avion, c'est vraiment chouette. Mais maintenant, si je devais le reprendre, j'aurais qu'une angoisse, c'est pas que l'avion n'atterrisse pas, c'est de savoir quel est exactement le bilan carbone que je viens d'avoir en prenant l'avion. Ça, c'est mon angoisse aujourd'hui. Effectivement, il y a plein de choses qu'on a fait pendant longtemps qui étaient cool. Aujourd'hui, on prend nos smartphones, on s'en fout, on a une vie de, parfois d'un peu de riche, de bourgeois, on se balade, le pognon tombe tout seul, on fait bar sur bar, on se poste, on met les photos de nos bières, on se prend en photo en train de se bourrer la gueule avec les gens, on est heureux, on vit. Et on ne se rend pas compte que pendant qu'on fait ça, il y a d'autres personnes qui ne vivent pas. Et pas que pour des raisons sociales, pour des raisons physiques. Et ça, ça pose un problème. Donc effectivement, il va y avoir besoin de valider. Parce que je pense que communiste ou pas, et mise en commun ou pas. Je pense qu'aujourd'hui d'un point de vue sociétal, ça va être un accord commun de dire on va vraiment vraiment avoir des problèmes dans les années qui viennent. Et ça, c'est un point de vue qu'on va avoir en commun. Tout le monde n'aura pas les mêmes problèmes, mais les problèmes vont se rassembler et vont aller dans la même direction. À nouveau, ce qui compte, c'est le coût du changement. C'est le coût de continuer ce qu'on fait aujourd'hui, c'est pas le coût de changer. Changer, c'est pas si difficile que ça. Quand on dit aux gens à chaque fois qu'il y a une élection quelque chose et combien coûte et combien coûte et combien coûte et que vous essayez de remettre en question ça en gros que vous alliez contre la direction donnée aujourd'hui de cette croissance infinie et du fait que quand elle pourrit de plus en plus on peut se permettre d'être des libéraux quand vous commencez à faire ça euh, bah vous arrivez euh, à des choix et vous arrivez à dire aux gens euh, soit on continue comme aujourd'hui Soit on revient en arrière et on essaie de réfléchir. Et oui, c'est pas facile, et oui, il y a des gens qui vont essayer de passer sur le côté. Mais on leur rappellera toujours que ceux qui sont passés sur le côté sont ceux qui, aujourd'hui, conduisent le monde à être euh, ce qu'il est aujourd'hui. Je note ta question, Daniel, au fur et à mesure. Le point de non-retour, euh, non si, je pense qu'effectivement, on doit être euh, normalement... Euh, le point, enfin, de, de consommation écologique, je sais pas ce que tu penses... Euh... Le of Day, euh, celui où on a mangé plus de ressources que la planète ne les renouvelle. De mémoire, c'est 1,6, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, on doit être normalement à début septembre. Ça doit être pas maintenant. Je fais cette conférence au début septembre. Donc, voilà. Rappelez-vous que dans le doute, si on continue de faire tout comme aujourd'hui et qu'on va essayer d'étendre infiniment ça, il s'agit bien du pire scénario envisagé par le GIEC. Le pire. Donc, aujourd'hui, tout ce qui va contre ça n'est qu'autre chose que le pire. Donc la question c'est, est-ce qu'on va trouver une économie libérale et capitalistique, où on va chercher des moyens Est-ce qu'on va laisser 25 sociétés développer leur pub pour savoir si elles peuvent capter le carbone mieux que les autres C'est à vous de voir, c'est pas à moi de vous dire. Donc n'oubliez pas, quand vous allez commencer à implémenter, utiliser des solutions, il faut penser profondément en termes d'éthique. Il faut penser pour qui est-ce que ça a été fait Qu'est-ce qu'ils vont en faire Est-ce qu'ils vont l'utiliser Comment ils vont l'utiliser et combien ça va coûter pour la planète, quel va être le coût pour la planète. Je peux vous donner un exemple tout simple, hein, en termes de logiciel, parce qu'on va commencer à parler un peu de logiciel, mais je suis en train d'essayer d'acheter une maison, parce que j'ai un peu l'argent maintenant, et voilà. J'essaie des sites de vente euh, immobiliers, et des agrégateurs de données immobilières. Il n'y a aucun des dix premiers sites que j'ai utilisés, qui sont les premiers résultats dans le meilleur moteur de recherche du monde, qui est Google, qui offre comme critère de tri, les diagnostics de performance énergétique, qui sont les balbutiements du début de l'expression d'une volonté de dire aux gens ⁇ peut-être vous devriez prendre l'écologie comme, euh, comme critère ⁇ Et bien ce truc-là n'existe même pas. Vous pouvez prendre les dix premiers sites de recherche, il est spécifié pas toujours d'ailleurs, alors c'est légal normalement, euh, il existe, quand vous prenez une offre immobilière, vous voyez quels quelle sont les, les, les diagnostics de performance énergétique, donc euh, les émissions de gaz à effet de serre et l'émission, euh, le, 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 la source d'énergie primaire, combien elle prend l'environnement, etc. Dessus, Et bien ce truc-là qui devrait être un facteur principal, primordial aujourd'hui, n'existe même pas comme facteur de tri secondaire. Il faut se palucher les annonces une par une. Au passage, ça veut dire ouvrir plein de pages et faire charger plein d'URL avec plein de serveurs internet qui ne servent absolument à rien et qui ne donnent aucune donnée sur nous parce qu'en fait, on va voir des choses qui ne nous intéressent pas. Est-ce que vous pouvez y croire à ça C'est même pas montré parfois alors que des fois c'est un, un caractère obligatoire. Et pourquoi est-ce que c'est pas un critère Parce que la plupart des maisons et des logements que vous voulez aujourd'hui, ils puent. C'est des vieilles maisons qui sont ridicules, qui ont des notes dégueulasses, qui vont au mieux demander des tonnes de travaux pour à peine arriver au standard de avant-hier. Pour laquelle les, les, les gens en fait se foutent complètement. On renouvelle en France à peu près un millième du parc immobilier chaque année. La plupart des personnes s'en fichent. Elles vont refaire la déco et vont jamais chercher à comprendre pourquoi leur maison coûte beaucoup d'énergie. Pourquoi Parce qu'à nouveau la facture d'électricité par rapport à ce qu'elles vont gagner va être ridicule. La facture de gaz va être ridicule. Quand ces trucs-là vont devenir des choses qui vont coûter très cher ou qui ne seront plus approvisionnement, la maison toute entière ne vaudra plus rien. Il ne suffira pas d'avoir une cheminée. Donc voilà. Mais comment changer le monde si par exemple à l'échelle d'un site web, on ne peut même pas avoir ce critère de tri-là sur un truc aussi simple que ça Bon, du coup, je viens d'assimiler un petit peu ça. Si on résume, euh, qu'est-ce qu'on fait pour changer le monde et qu'est-ce qui va mal Bon, on a entré un... Une ère depuis quelques années maintenant qui nous amène vers une catastrophe globale, essentiellement en faite de points de non-retour avec très peu de sorties correctes. Et le vrai, ça sera des impasses. Deuxièmement, il n'y a pas d'énergie verte. En gros, il n'y a rien qu'on puisse faire dans les standards d'aujourd'hui qui euh, nous permette de soutenir nos standards euh, et no notre rythme de vie actuel. Tout ça va s'arrêter bientôt et ce n'est pas demain après-demain, ce n'est pas vos enfants, ce n'est pas les générations futures, c'est maintenant tout de suite pour nos gueules. Ensuite, le monde est fini, les matériaux sont finis, tout à notre, range, à notre portée est fini. Et on est beaucoup, 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 beaucoup trop loin aujourd'hui en termes de consommation de matériaux sur notre planète. Donc la croissance qui était euh, virtuelle est finie elle aussi et va s'arrêter. Et si elle s'arrêtait, ça serait facile, elle va décroître. Et on se rapproche de point de vue dangereux de cette asymptote il y a encore quelques années où tout ira à peu près bien et vous voyez, tout ne va plus déjà à peu près bien. Par le simple fait de ne pas savoir, on augmente la pollution en ignorant des faits sur notre planète, en ignorant, en n'étant pas au courant de ce qui se passe, de la situation actuelle et en répandant des mensonges parfois contre -productifs. À nouveau, vous êtes vous-même une structure. Quand vous pensez que vous allez sauver votre petit cul jusqu'au bout et rejeter les accusations en surcommuniquant et en mentant sur votre activité, vous ne résolvez rien du tout. Vous vous rendez toutes les choses pires. Donc, dans le doute, ne faites rien. Ne prétendez pas être dans le sens de l'écologie si vous ne faites rien. Et non, trier les poubelles à la, à, dans la salle de pause, ça suffit pas. Euh, les premières choses... Euh, les premiers qui ont... Qui ont... Essayer de faire ça, euh, les premières structures qui ont essayé de faire ça, ont déjà été depuis longtemps euh, montrées du doigt publiquement et elles ont pris leur dose de honte publique. Ensuite, on sait que les problèmes auxquels on fait face sont de plus en plus complexes. Tous les coups qu'on va avoir aujourd'hui seront des coups à trois bandes. Tout va, re va requérir trois fois, quatre fois notre attention. Il n'y a rien d'évident. Quand on pense que d'un côté on va réduire certains coûts en changeant les carburants, en changeant les batteries, en changeant la manière de faire, etc., on va regarder et on va se rendre compte que le processus de fabrication derrière consomme lui aussi plein de matériaux qu'on n'a plus. Donc en gros, en pensant en résoudre un problème, on va créer et aggraver un autre problème à côté. Il n'y a rien qui soit facile là-dedans. Absolument rien. Ne prenez surtout pas l'information qui vous plaît en premier, faites une pause et demandez-vous toujours si vraiment il n'y a pas un autre problème derrière. A chaque fois que vous entendrez, que vous lirez quelque chose à propos de quoi que ce soit, essayez de douter de vous-même et doutez tout autant de vous-même que vous doutez du reste du monde. Et pour finir avec une partie un peu plus spécialisée sur le numérique, on va finir avec l'idée bornée et qui ne jamais fléchit et flanche qu'on peut toujours essayer de s'attaquer au problème de notre côté, celui du monde du numérique. Parce qu'il y a des solutions, alors j'ai essayé de mettre les solutions en trois parties. Les solutions pour les individus, pour les sociétés du numérique et pour les travailleurs du numérique. Donc d'abord, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'individu ben C'est facile, on peut supprimer tous les emails, les vidéos et l'historique qu'on a derrière. Autrement dit, il faudrait pouvoir sur toutes les plateformes vider complètement les conversations, vider tout ce qu'il y a derrière. Ça vaut pour Facebook, ça vaut pour Snapchat, Instagram, WhatsApp, ça vaut pour tout. Vider, virer vos conversations. On n'est pas sûr que de l'autre côté, les solutions de leur côté le virent, mais au moins que nous, on ne le voit plus passer. Supprimer tout votre chat, tout votre historique. Supprimer tous les documents partagés que vous n'utilisez pas strictement de manière réelle maintenant, comme par exemple moi cette présentation. Supprimer tout vos backups et vos stockages en ligne dont vous n'avez plus rien à faire. Utilisez, quand vous faites des mails ou des petits messages en messagerie instantanée, des répondre à tous ou de, rép de répondre à la personne et faire répondre à tout le monde. Ne créez pas des groupes, des milliers de groupes sans, sans raison. Quand vous diffusez un message à 10 personnes, vous diffusez 10 messages, pas un message. Surtout si 9 sur 10 s'en foutent complètement. Ensuite, désactivez les notifications. Elles sont stockées quelque part. Elles existent, les notifications. Elles sont pas gratuites. Utilisez, pour ce qui est du Internet des raccourcis. Faites des bookmarks. Ça va beaucoup plus vite, et sur mobile aussi, ça existe. Plutôt que de prendre Google pour aller chercher où est-ce qu'est le résultat de telle recherche. Si vous vous souvenez plus, euh, par exemple, je sais pas, du nom de mon site web à moi, bah, mettez-le en favori quand vous l'avez retrouvé, plutôt que de vous dire, je reviendrai dans Google le chercher, je relancerai la recherche, je vais encore polluer la planète, pour rien. Vous faites deux détours, vous utilisez trois, deux ou trois sites web pour rien, d'accord Et en plus, si vous ne trouvez pas, c'est vraiment pourri. Ensuite, il faut prendre le temps. N'attendez pas que les mails arrivent chez vous pour les supprimer. Revenez à la source, désabonnez-vous de tous les emails, les newsletters, il faut arrêter ça. On est en 2021, les newsletters c'est fini. Terminé. Ça fait des années qu'on les pousse dans la glotte des gens en faisant croire que les trois personnes qui les fabriquent avaient encore l'utilité, elles n'en ont pas. Foutez ça dehors. Ensuite, supprimez toutes les applications que vous n'utilisez pas. Sur un ordi desktop, sur un ordi portable, sur un micro-notebook, sur votre tablette, sur votre smartphone, sur votre montre connectée. Enlevez toutes les applications que vous n'utilisez jamais. Ensuite, désactivez la sauvegarde automatique dans le cloud de vos photos. Ça ne sert absolument à rien. Alors oui, on a vu des images superbes sur YouTube où quelqu'un s'est fait voler son smartphone un jour, euh, a réussi à regarder en, en prenant les vidéos et là où elles avaient été prises. Euh Quelqu'un qui était un peu idiot, qui a utilisé son compte, etc., et qui a continué de prendre des photos, et du coup, le smartphone était retrouvé. Ça, c'est fini. Maintenant, on a le localisation et le verrouillage à distance. C'est terminé en cas de vol. Il n'y a plus besoin de faire ça. Et si vous avez, pas... si vous avez besoin de garder certaines photos vous-même, faites-le manuellement. Triez-le. Ne vous dites pas, peut-être que demain, mon smartphone va tomber dans la flotte et je vais garder les photos. Ça, c'est une responsabilité à vous. Un smartphone qui tombe dans la flotte, dans la flotte et qui est pourri, qui explose, ou qui fond, ou qui brûle, c'est une... une conséquence pour l'humanité. Vous allez devoir. Ça vous, mais tout le monde va le payer collectivement, donc faut prendre soin de ce que vous avez derrière. Ok, ensuite essayez de télécharger. Plutôt que de regarder en direct les choses. Regardez des vidéos YouTube pour écouter de la musique, c'est pas top. Regardez, allez sur je sais pas, Spotify, ce que vous voulez, pour écouter les musiques dessus, c'est pas top. Essayez de prendre le mode hors ligne pour avoir un cache local pour télécharger vos trucs dessus. On sait que télécharger les MP3, c'est un truc de vieux ringard, de vieux boomer. N'empêche que pour ça, même en cas de coupure de, de courant chez le fournisseur de l'accès Internet, vous avez encore votre ordi qui marche chez vous, vous pouvez encore écouter de la musique. Ensuite, essayez, c'est pas ce que je suis en train de faire, désolé, mais c'est pour la bonne cause, de ne pas abuser du streaming 1 vers N, c'est-à-dire de la diffusion vers une communauté. C'est-à-dire qu'en fait, vous allez poser un truc qui va être derrière vu sur le net. Okay Ensuite, essayez d'utiliser des signatures légères, ou pas du tout de signature parce qu'à vrai dire, je peux le faire en ASMR, tout le monde s'en fout de votre signature. Donc, tiens, qui permet. N'abusez pas de l'upload automatique de fichiers dans les messages. C'est pas la peine de les garder pour 1000 ans. Euh, Limitez l'usage tiers pour des petites tâches. C'est pas la peine de prendre une application pour faire plein de choses dont vous n'avez pas besoin d'habitude. C'est un business model pour quelqu'un quelque part, mais on ne lui a pas demandé son avis. L'usage de la vidéo, des streaming, des conférences, etc. Essayez de le limiter. Essayez de pas être Coller toute la journée en train de regarder des vidéos. Et surtout, si vous le faites, n'oubliez pas que on fait tout pour que vous y restiez. Les YouTube Springs, ça existe et ça a un sens. Euh, essayez d'utiliser des moteurs de recherche responsables. Je ne vous en donne pas, vous émerdez. Euh, la page d'accueil de google.com est un moteur super responsable. Google.com, le moteur de recherche, l'est pas forcément. Même si on l'a vu, ils ont fait des efforts pour certaines choses. Regardez, je sais pas, Ecosia ou des trucs comme ça, ça marche aussi pas mal. Ensuite, de manière générale. C'est pas la peine d'imprimer, on sait que plus personne n'imprimante chez lui, mais il y a encore des gens qui le font, surtout au boulot. Et en bout, ce boulot c'est gratuit, généralement, n'imprimez pas. Et quand vous imprimez, essayez de faire attention à la qualité du papier, à faire du recto verso, etc. C'est super simple. Ensuite, vous allez enlever toutes les applications, vraiment, je le redis, euh, qui ne sont pas utilisées tout le temps. Donc j'ai dit à l'heure celles qui ne sont jamais utilisées, mais aussi, ça c'est plus dur, celles qui ne sont pas forcément utilisées, voire jamais. Au bout d'un moment, vous dites, est-ce que je ne peux pas arrêter de l'utiliser et transférer mes contacts vers une autre application Genre, euh, arrête d'utiliser X, utilise Y. Si les gens ne sont pas contre, c'est plus la peine de garder l'application. Parce que c'est facile de le créer un compte, mais sans servir jusqu'au bout, c'est difficile. Ensuite, utilisez les documents partagés. Documents partagés, vous allez récupérer à peu près 80% d'économie d'énergie. Il y a eu des études très sérieuses là-dessus. Plutôt que d'envoyer des. Par exemple travailler au boulot, vous faites un document en ligne dans n'importe quoi, dans le Outlook Live, enfin Office Live 365, ou dans, dans Google Drive, ce que vous voulez, ça va être beaucoup, beaucoup plus, ça paraît fou, mais ça va être beaucoup plus efficace que de faire 50 mails avec une pièce jointe qui contient un document Word en pièce jointe où les gens vous envoient la V1, V2, V4, V6, etc. Ça, il faut vraiment arrêter ça. Il ne faut plus jamais recevoir de pièce jointe euh, dans des mails avec ça. Ou alors, il faut très vite les stocker sur email email Ensuite, euh, il faut faire, et là c'est beaucoup, beaucoup plus dur, il ne faut plus utiliser les applications, les sociétés qui ont comme modèle économique le revenu basé sur la pub. Et alors là, j'ai pas la solution, ça veut dire qu'il faut couper tout le monde. Donc, il faut peut-être commencer à encourager les gens à dire ben, est-ce que ça peut devenir payant Aujourd'hui, si Facebook dit je ne fais plus de data, je ne vends plus de data, on enlève les régies pub et vous passez un abonnement à 20 euros par mois, combien de personnes vont garder Facebook Donc voilà. Euh, truc très facile à faire. Euh, quand vous ne faites rien de spécial avec votre ordinateur, utilisez simplement un portable. Un portable, ça consomme au max 40-50 watts d'énergie, au minimum 3 watts, maximum, pas bah plus, donc ça tient longtemps allumé, pour aller sur le net, pour regarder des vidéos, regarder sur Netflix ou ce que vous voulez. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple. Il n'y a pas besoin d'avoir une machine de guerre pour ça. Et si vous voulez regarder sur un grand écran, bah mettez juste un grand écran type télé, grand écran d'ordi, etc. Mais l'ordinateur de bureau, ça consomme beaucoup plus. Il faut l'utiliser parce qu'on a une raison. Euh, bosser avec, euh, faire de la photo, faire de la vidéo, euh, faire de la musique, euh, bosser sur de la modélisation 3D, euh, jouer sur des jeux vidéo, etc. Il faut le justifier. Il faut que ça soit sur un truc vraiment plus bourrin. Ensuite, faites attention à utiliser des, des microprocesseurs qui soient à économie d'énergie. Alors je vais pas vous faire la liste, mais par exemple chez Intel qui est un gros vendeur, vous avez un U comme Universal Energy Saving, etc. dessus. Je ne sais plus ce que je vais vous dire, mais il y a un U souvent dessus. Donc renseignez-vous sur les gammes de processeurs qui sont sur les machines et vous verrez que souvent ils sont économiques. Alors, spoiler, en général, c'est très lié à la durée de vie euh, estimée de la batterie. Enfin la durée de vie par chargement. Hein. Quand vous allez à un ordi qui vous dit ben en fait il tient deux heures allumées, euh, là si vous dit trois heures, c'est pas un hasard, c'est pas le même ordinateur, pas le même CPU dans l'ordinateur. Euh, deuxième chose au passage, euh, les écrans. C'est pas compliqué, plus l'écran est grand, plus ça coûte cher. Un smartphone avec un écran plus grand, c'est pas un signe de richesse, c'est un signe de pollution. Un écran euh, d'ordinateur desktop, un écran d'ordinateur notebook, smartphone, euh, tablette, ce que vous voulez, qui est plus grand, ça pollue plus. Et alors là, c'est pareil, c'est une courbe directe. Un smartphone qui fait 6 pouces par rapport à un 5 pouces, il va consommer, je sais plus, c'est euh, 5%, 10% d'énergie en plus. Un 7 pouces, c'est encore 7 pouces. C'est strictement lié. L'essentiel de l'énergie est diffusé par l'écran. Pas que, mais c'est une bonne partie. Donc, plus c'est gros, plus ça consomme. Et moins ça va durer d'ailleurs au passage, parce que plus la batterie va s'user vite. Okay Ensuite, bah, tout simplement, ne faites pas de vidéo quand on peut faire autre chose que de la vidéo. Ça paraît con parce que la vidéo elle est gratuite et qu'on vous encourage à la faire. Parce que sous-entendu, ça stocke facilement. Non, la vidéo, c'est 30, 60, 120, 200 images par seconde des fois. Complètement démentiel, ça écrase complètement le poids des images en termes de taille. On est sur du x30x60 au niveau stockage. Faites très attention à ça. Ensuite, ne faites pas des contenus éphémères. Euh, les stories, par exemple, ça ne sert absolument à rien. Et surtout, ne faites pas des stories, donc des contenus éphémères, pour euh, faire la publicité de vos contenus fixes. J'en vois beaucoup, beaucoup trop sur les réseaux sociaux. Arrêtez strictement, parce que ça, c'est facile et gratuit, de faire une story pour dire que vous venez de poster un truc sur votre compte. Vraiment. On est au courant, on l'a vu, on est abonné. Merci, bisous. Ok euh, Ensuite, ne repostez pas euh, les, les, les contenus. Euh, de, de plusieurs fois, ou ne, ne, ne faites pas un post euh, similaire avec un commentaire différent à chaque fois pour dire la même chose. Quand c'est une image de vous dont vous êtes très fier, une photo de vous en tant que pas modèle ou en tant que photographe, etc., on l'a vu, c'est bon. Donc supprimez l'ancienne si vous voulez, remettez-la, mais ne faites pas 50 posts pour refaire la même promo de votre truc. Il y a plein de gens qui, quand ils n'ont plus d'idées, remettent des vieux contenus qu'ils avaient fait il y a 10 ans. C'est pas la peine. Alors, des fois, c'est un throwback. On dit Waouh, voilà ce que je faisais il y a 10 ans, c'est marrant. Mais quand c'est une photo qui a été postée 3 ans avant, qui n'a pas de contexte, c'est juste fait pour dire C'est comme si on venait de la faire à l'instant. Les gens disent Waouh, c'est génial. Et vous regardez les commentaires, c'est les mêmes commentaires qu'au début. Tout ça pour générer l'activité. Ne le faites pas. Ne repostez pas les choses, ça ne sert absolument à rien. Au pire, postez de nouvelles choses. Ensuite, plus généralement, pensez avant d'utiliser les réseaux sociaux. Ça, c'est super dur. Ça veut dire, en gros, avant même d'aller dessus, posez-vous la question si vraiment ça va être utile ce que vous faites avec. Ou Juste si vous, vous faites chier, euh, pensez que les lire ça va faire générer des pages et ça va coûter et polluer. Donc, le simple fait d'aller dessus, même quand vous postez rien, ça pollue. Ensuite, dites-vous simplement socialement je l'ai rappelé un ami il n'y a pas longtemps que l'engagement, c'est-à-dire les likes, les chats, etc., les commentaires, tout ça ne définit pas votre valeur. C'est pas parce que vous avez fait un post où personne n'a réagi qu'il faut vite en refaire trois de plus pour vous dire Putain, j'ai plus d'amis ou les gens m'aiment plus. Les gens vous aiment toujours autant et vous aimeront encore plus maintenant qu'ils savent ce que ça veut dire si vous polluez moins, donc vous postez moins. Ensuite, n'abusez pas du partage vidéo euh, dans les médias. C'est-à-dire quand vous partagez des choses, si ce que vous partagez derrière est une vidéo euh, sur n'importe quelle plateforme de vidéos, les gens vont lire plus de vidéos. Donc forcément, ça va être compliqué. Vous pouvez parler de la même chose sans poster les vidéos avec. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont voir le post, ils ne vont pas lire ce que vous avez écrit, ils vont juste cliquer sur la vidéo, ils vont dire ça ne m'intéresse pas, je passe à la suivante. Mais ils ont ouvert la page. Ensuite, euh, mettez à jour vos mots de passe et vérifiez votre sécurité numérique, c'est très important, parce que ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent, de temps et de pertes pour tout le monde de se faire voler ses comptes, ses images, etc. C'est une perte de temps et d'occupation pour vous comme pour tout le monde. Ensuite, on va la faire simple. Les crypto-monnaies, c'est de la merde. Le principe est génial, mais les crypto-monnaies qui ont été créées par les individus euh, qui ont fait ça encore une fois comme initiative personnelle, c'est absolument pourri en tête, en tête, en tête, la première historiquement mise sur le marché. C'est-à-dire le Bitcoin est une usine à gaz, virtuellement et physiquement aujourd'hui, qui pollue à mort. J'ai plus les stats en tête. Le Bitcoin est une putain de centrale à charbon permanente qui tourne H24 et qui consomme autant que quasiment certains pays juste pour le minage et la validation de la blockchain. À un moment donné, il faut dire stop. Bon bah. Non voilà, c'est juste de la spéculation matérielle, euh, en fait vraiment physique. Le Bitcoin c'est pas virtuel, c'est physique. Hein. Si vous enlevez les ordinateurs qui stockent les trucs, les clés USB sur lesquelles ce c'est stocké, vous paumez tout. Et ce qu'il y a dedans, ça sert absolument à rien, ça n'existe pas s'il n'y a pas de matériel dessous. Et le matériel, il a un coût. Et celui que ça utilise pour ça, je veux dire, il n'y a pas longtemps, j'ai vu en France une société dont je tairai le nom qui vend des radiateurs dans lesquels vous mettez des cas de graphiques pour chauffer chez vous, tout en minant des crypto-monnaies. C'est le summum de la débilité. Vraiment, j'ai pas d'autres mots. Ensuite, faites attention, je vous ai dit de tout mettre dans le cloud uniquement pour ne pas l'avoir à bon, etc. Mais n'allez pas trop non plus mettre quand vous avez des gros euh, fichiers à stocker. En fait le stockage physique avec des disques physiques, de l'USB si vous voulez, mais voilà. Euh, ça marche super bien, vraiment, c'est pas la peine. Et les disques durs vivent très bien. Et les normes informatiques, même si les tailles augmentent, bah c'est quand même les mêmes depuis longtemps. Et on trouve quelques câbles de rétrocompatibilité. On peut faire fonctionner aujourd'hui sur un ordinateur qui date de 2021 des disques durs qui datent il euh, bah, y a 20 ans sans problème. Et 20 ans, c'est déjà beaucoup. 30 ans, c'est un peu dur. Mais maintenant, on commence à stabiliser quand même. Hein. Donc voilà. Ensuite ça on l'a 800 fois, éteignez vos euh, machines tout le temps éteignez tout ce qui peut être allumé, qui peut consommer quand c'est en veille, ça consomme encore et donc ça c'est pas facile, il faut s'organiser, il faut des multiprises, il faut des trucs dessus. Euh, si c'est pour les box internet qui consomment beaucoup beaucoup beaucoup, il faudrait qu'elles puissent redémarrer avant que vous vous leviez le matin, tout ça. Donc il y a moyen de faire des maisons intelligentes, ça existe, on peut programmer des prises, on peut les trouver à distance, on peut faire des capteurs qui sont très basse consommation, qui resteraient la seule chose allumée chez vous, qui vont dire tiens t'es levé, je remets en marche la box, ça peut se faire, on va y arriver, faites attention à ça, c'est vraiment intéressant, c'est pas que du gadget. Euh, et surtout, de manière générale, faites attention à tout ce que vous possédez. Quand vous cassez un smartphone, vous cassez pas votre smartphone, vous cassez la planète. Ça, c'est super dur. Il faudrait vraiment, vraiment plus vous en vouloir. Et il faut essayer de faire durer les choses. Il faut essayer de ne pas changer tout de suite. Ça veut dire qu'en gros, ne pas changer, vous devez demander vraiment et insister sur le fait que toutes les lois doivent être en faveur des éléments réparables et recyclables. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les améliorer et avoir euh, tous, les, tous les deux ans euh, des machines qui vont deux fois plus vite. Moi, c'est ce que je fais avec un ordi. J'ai le même ordinateur desktop depuis euh, 20 ans, en fait, et j'ai changé une seule partie à la fois au fur et à mesure. Je n'ai jamais cessé ça. Quand un truc a cassé, réparé, enfin, fondu, ça peut arriver des fois, j'ai juste changé ça. J'ai pas changé autre chose. Quand ma carte graphique a lâché, j'ai acheté une nouvelle carte graphique. J'ai pas acheté un nouvel ordinateur. Ça c'est vraiment important. Donc voilà, et vous avez vu qu'aujourd'hui la destination vers laquelle on se dirige pour les smartphones, c'est pas ça. Donc ensuite, faites attention à vos besoins. Le commerce vous pousse absolument à acheter des choses plus chères que ce que vous pouvez payer et ça c'est absolument possible. Il faut absolument vérifier vos besoins. N'allez pas plus loin que vous faites. Ensuite, le marché euh, secondaire, on va dire donc l'occasion, c'est vraiment cool et en plus ça explose, il y a des raisons pour ça, c'est que ces temps-ci, c'est vraiment vraiment très utile. Le marché d'utilisation secondaire est une très bonne idée. D'accord Ça va loin, ça va jusqu'au au, au covoiturage, ça va jusqu'à la réutilisation de choses dessus, ça va jusqu'à la copropriété de voitures, etc. Enfin, il y a plein de choses qui, qui expliquent, les gens testent des trucs et il euh, n'y a pas que Jeremy Rifkin qui pense que l'économie solidaire, ça marche bien. Ensuite, commencez par vous poser des questions sur la réparabilité, la faculté à être réparée de ce que vous allez utiliser. Si votre truc, par exemple, je ne sais pas, est fixe et qu'on vous dit qu'il y a un indice de 2 sur 20, il ne faut pas l'acheter. Un exemple tout bête, est-ce que vous pouvez changer la batterie de votre smartphone, sachant que c'est la principale raison pour laquelle vous allez le foutre en l'air Vraiment, vous allez changer à cause de la batterie avant de dire le smartphone me plaît plus. Ensuite, recyclez tous vos appareils électroniques. Si, c'est possible et c'est même pas dur. Dans toutes les villes, notamment en France, mais pas que, euh, il y a des endroits où vous pouvez ramener des tonnes de bordel, des cartes mères, des ordinateurs, des écrans, et ils reprennent tout. Vraiment. Ensuite. Quand vous allez parler en public, si vous n'êtes pas modéré quand vous parlez, ne parlez pas. Si vous n'êtes pas capable d'écouter les gens, alors c'est dur parce que je suis en conférence et encore j'ai répondu à deux questions entre temps, ne, ne parlez pas aux gens. Si vous, si vous n'êtes pas capable de mettre de l'eau dans votre vin et de dire euh, je ne sais pas, je doute ou on ne sait pas derrière, si vous n'êtes pas capable de dire de manière non absolue ce que vous dites, c'est-à-dire que soit vous le savez et vous apportez tout de suite la preuve parce que la personne en face de vous va, va avoir le temps de la regarder, soit. Ça va être difficile. Quand vous faites ça, si vous faites ça en ligne, vous allez créer encore plus de réponses et de réactions de la part des gens. Donc c'est super, super pas responsable du tout. Ensuite, essayez de ne pas prendre pour argent comptant n'importe quelle citation de n'importe quel spécialiste. Prenez plutôt des groupes de spécialistes ou des études générales qui sortent et qui disent voilà, ça a été fait à partir de 150 études, etc. En arrière. Ensuite, trouvez comme ce que je viens de faire là des cours sur tout ce qui est scientifique en ligne. La science, n'est pas un truc au milieu de tout qu'on met à égalité avec la philosophie, la littérature, etc. C'est un truc qui, aujourd'hui, si on le pomme, on va vite avoir plein de problèmes, on n'aura plus le temps de se poser les questions sur la littérature, la philosophie, la science, etc. Si, si vraiment, demain, on est tous dans la merde et qu'on perd tout, que les gens s'entretuent, je vous garantis que la science, on va la regretter. En premier, une fois qu'on aura la science, on pourra s'occuper du reste, évidemment. La philosophie, la philosophie va avec la science, c'est essentiel, elles sont entremêlées les deux, et on ne peut pas avancer l'un sans avancer l'autre. Mais le problème, c'est que si vous mourrez à 15 ans parce que vous avez été chassé par des animaux sauvages et que sinon vous plantiez des patates la journée en espérant qu'elles poussent, euh, j'assure que le temps de philosophie il va pas être très très long. Hein. Donc voilà, et que la temps vous êtes pris par des gastroentérites monumentales parce que vous bouffez n'importe quoi, ça va être très difficile. Donc il faut absolument que tout le monde se réapproprie un fond de culture scientifique pour avancer. C'est un truc qui est absolument obligatoire. La direction de l'éducation dans les pays du monde prend et est prise, si vous voulez, mais elle n'est pas suffisante. Il faut pas compter que là-dessus. Essayez de comprendre vraiment comment fonctionne la recherche et la science. Si vous ne voyez pas ce que je veux dire, c'est que vous n'avez pas cherché. Je ne l'ai pas, pas trop expliqué ce soir le, la notion de consensus, les études, la leçon par les pairs, etc. Regardez aussi la différence qu'il y a entre la recherche et la science. Quand le premier dit "on sait pas, mais on cherche", le deuxième dit "on sait et on le prouve". C'est pas la même chose. Apprenez. Des connaissances fondamentales sur l'énergie, la matière, la chimie et l'informatique. Vraiment, c'est super important. Euh, la biologie, c'est intéressant. Euh, la génétique, euh, vraiment, tenez-vous au courant. Il y a des sources qui sont super gays, qui vous balancent des trucs tous les jours. Et je vous jure, vous n'allez pas vous embêter une seconde. Et c'est beaucoup plus cool que de savoir s'il si y a eu un meurtre à Champigny-sur-Orge la veille. C'est vraiment plus important d'apprendre ça et de s'occuper de ça. Vraiment. Aussi intéressant et dangereux, soit les personnes qui se font tuer, évidemment. Ce que je veux dire, c'est que faire huit semaines sur. Euh un, un, je ne sais quel meurtre, quel caractère, machin Enfin, ça n'a pas d'intérêt au bout d'un moment voilà. Essayez de vous forcer à apprendre un fait scientifique Une découverte scientifique, chaque semaine Au début c'est dur, et après vous allez prendre le rythme euh, Si ce que vous lisez vous a l'air de vous plaire Et vous vous dites, ouais, ça a l'air simple et cool Dites-vous que quelque part, quelqu'un a envie que vous le lisiez Donc, vérifiez deux ou trois fois, ça vaut le coup Et ensuite, questionnez les sources y compris celle que vous choisissez, y compris moi-même aujourd'hui. Sans problème, d'accord Et ensuite, ne vous comportez pas euh, à l'extérieur de chez vous comme vous ne l'accepteriez pas chez vous. Ne tapez pas sur les machins en boulot, ne laissez pas tomber les écrans, ne n'arrachez pas les câbles, etc. Si vous ne le feriez pas chez vous. Essuyez-vous les pieds si vous le faites. Voilà. De manière générale, adoptez un comportement qui soit pas juste sous le prisme de est-ce qu'on peut me le reprocher, mais est-ce que vous-même, vous pourriez vous le reprocher à vous-même, d'accord n'oubliez pas de tout éteindre de faire attention à votre lieu de travail pour ce qui est professionnel c'est important aussi apprenez à travailler plus près de là où vous habitez ou habitez plus près de là où vous travaillez euh, arrêtez vraiment d'acheter du matériel de merde euh, ça c'est vrai, ça c'est bien, c'est vrai si vous passez de 3 à 5 ans de cycle de vie pour les ordinateurs portables, c'est 37% d'émissions de gaz à effet de serre en moins. Si vous passez de 2 à 3 années et demie de cycle de vie pour les smartphones, c'est 26% en moins et de 20 à 70% euh, des smartphones aujourd'hui qui ont... Euh, qui ont deux, deux cartes SIM dessus, ça aussi, ce marché-là a, a économisé 37% de gaz à effet de serre dessus. Ça, c'est plutôt pas mal en fait. On, on, a, on a des trucs vraiment intéressants. Les, les doubles SIM, vous savez, c'est celle où vous avez le, le téléphone perso et pro dans la même machine et vous avez juste deux cartes SIM, un avec vos applis, votre machin, etc. et vos appels à vous et l'autre qui est l'appel de l'autre côté en fait. Vous avez, vous mélangez les deux, il est fourni par l'un ou par l'autre et après on s'arrange pour savoir le jour où vous partez qui garde le téléphone et pourquoi. Ok Deuxième partie des solutions, ce que vous pouvez faire en tant que structure liée au numérique, d'accord euh, Il reste plus que ça avant la fin, je vous assure, je vous promets. Euh, donc voilà, ceci est un truc qui est essentiel. Quand on regarde les sondages aujourd'hui à travers le monde, dans tous les pays développés, pour ce qui est des employés, des travailleurs du secteur du numérique, l'adoption des sociétés elle est toujours toujours sous ce prisme là. la responsabilité de société prime sur les conditions de travail et les conditions de travail prime sur le revenu. Arrêtez de croire que le salaire ça fait tout, le salaire fait partie des choses mais il y a plein de gens qui quittent des boîtes où ils sont très bien payés sans problème d'accord Donc le monde change de l'autre côté et si vous vous êtes une société numérique est-ce que vous changez aussi vite? celui- là il est un peu plus dur. Dans un monde dans lequel on est en effondrement l'argent va arrêter d'arriver. il faut s'y faire. Si vous savez pas ce que je veux dire, regardez vos comptes en 2020, vous allez voir, ça va pas marcher tout le temps. Au début, vous allez commencer par les trucs faciles, vous allez virer vos employés parce que vous avez des besoins structurels. Ensuite, bon voilà, vous savez comment vous fait, hein, comment ça se passe. Euh, vous savez déjà en faisant ça que le prochain qui met la clé sous la porte et qui met la main sur la poignée de porte pour prendre la porte et sortir, c'est vous. Et vous savez déjà que la clé est dans votre main. Ça ne veut pas dire qu'il faut garder tout le monde sans raison, ça veut dire qu'il faut savoir que l'économie, si vous ne l'avez pas vue venir, vous n'allez pas la gérer avec une gestion de proximité et au jour le jour. Ça ne marchera pas. Donc, pendant ce temps-là, les salaires et les augmentations ne sont pas à l'agenda. Ça veut dire qu'il va falloir revoir comment vous payez les gens équitablement et intelligemment. Puisque si vous n'avez pas plus de ressources qu'il n'y a rien d'entreprise, vous ne pourrez pas dire aux gens que vous allez être augmentés. Évidemment, les censures monétaires, elles dégagent. Ça veut dire que si vous avez des actionnaires, il faut racheter les actions, il faut racheter ce que derrière et il faut garder l'argent pour vous-même. Vous avez 15 ans pour le faire, pas plus. Une des plus grandes sources de succès euh, et de menaces pour la population, évidemment, c'est le marché de l'emploi. Euh une des plus grandes sources de succès pour le capitalisme et d'angoisse de, de, pour les gens, de suicide, de maladie, etc., c'est le marché de l'emploi. Le marché de l'emploi, ça détruit les gens, ça les ruine, ça coûte très cher à la société, peu importe comment, soit on le fait par du privé, soit on le fait par du public, enfin ce que vous voulez, dans tous les cas, ça coûte très cher à tout le monde et ça pollue à mort. Donc oui, c'est un peu dégueulasse de résumer les choses comme ça, mais quand les gens vont mal, ça pollue aussi. Et quand les gens vont mal, c'est toujours la faute de quelqu'un qui a bien fait exprès que ça arrive, d'une manière ou d'une autre. Donc... Pour ça, ça génère de l'anxiété, de la pollution des suicides, de la pression et de l'obéissance aveugle, ça génère des gens qui sont euh, aliénés par leur boulot, etc. Faites tout ce, que, ce qui est en vous, votre pouvoir pour combattre ça. Faites plus confiance à vos employés pour vous accompagner à piloter vos structures avec vous. Ils en savent plus sur votre société que vous ne le pensez. Et surtout, faites-les rester. S'ils s'en vont, ce n'est pas eux les responsables, c'est vous. Au pire, quand vous avez employé pour rien. Au mieux, quand vous n'avez pas aidé à rester. Maintenant, faites un grand pas en avant. Avant de penser à devenir des spécialistes, essayez juste d'établir un bilan carbone. Histoire de voir où est-ce que vous êtes et où est-ce que sont les gouffres autour de vous. Ensuite, essayez d'inclure cette notion de bilan carbone et de répercussion carbone et d'indice carbone, au pire, le vote, si vous voulez, dans tous vos projets. Il y, y a des choses qui se créent autour de vous, vous allez voir, vous n'allez pas être tout seul. Hein. Mais ne pensez pas ça comme une automatisation. Que vous allez un coup de tampon, que vous allez mettre en oui, c'est bon, enfin, bilan carbone, ça veut dire faites-le comme une valeur ajoutée. D'accord Ça peut penser faux et désintéressé. Si ça l'est, c'est vous qui perdez. Il faut que ce soit une vraie problématique pour vous, un vrai enjeu et un point sur lequel vous défendez votre capacité à vendre. Euh, spoiler si demain vous savez qu'on est dans le marché de la data, puis dans le marché de, du machine learning, etc., demain. Le nouveau marché, ça va être celui des sociétés qui sont capables de parler écologie. Si vous avez des vrais plans d'action et que vous prouvez vous que le Shell pollue moins, et bien vos clients pourront communiquer dessus en disant Waouh, c'est cool, on pollue moins. D'accord Ensuite, vous allez devoir supprimer tout ce qui est sur Internet et qui est basé sur la consommation. Et là, ça veut dire un truc compliqué. Comme les sociétés qui font des smartphones et qui ont besoin de fabriquer, donc de vendre des smartphones pour vivre, les sociétés qui offrent de la visibilité à travers la publicité ont besoin que vous achetiez les publicités. Ça veut dire qu'il va falloir enlever tous vos contenus et arrêter de les générer. C'est-à-dire que tous vos posts, partout sur les médias sociaux, les billets de blog, les publications, il faut les gicler. Ça veut dire qu'il faut plus de publicité. Ça veut dire qu'il faut arrêter de remettre vos posts. Ça veut dire que si vous allez sur LinkedIn et que tous euh, vos posts sont uniquement likés par vos employés, c'est que personne ne les regarde. Il faut arrêter. Et en tout cas, il ne faut pas utiliser un média public pour faire vos communications privées. Ça veut dire qu'il faut arrêter de reposter les choses. Si vous êtes un, une entreprise vous-même, que vous êtes une star ou quelqu'un de connu, c'est pas la peine de reposter 20 fois la même chose. Les gens n'ont pas besoin de savoir vous assister tout le temps. C'est pas ça qui va changer ce que vous faites. Ensuite, il faut arrêter de tracer. De suivre le comportement utilisateur sur vos infrastructures, sur vos sites, sur vos applis, à l'intérieur de votre entreprise. Il faut arrêter les 50 000 enquêtes d'opinion qui servent à faire ce que les gens veulent dessus, où est-ce que vous allez, etc. Où sont les badges, où sont les sessions Tout ça, il faut foutre ça à la poubelle. Il ne faut pas perdre votre temps, votre business à savoir ce qui se passe à l'intérieur. Il faut aller le chercher humainement, faire des enquêtes, mais pas, pas utiliser le, de l'automatisation comme ça. Ensuite, si vous voulez savoir comment faire économiser du pognon et de la souffrance à la planète, le règlement général des données privées, la RGPD, la GDPR en anglais, c'est absolument obligatoire. Vous devez être expert de ça et vous devez le vendre à chacun de vos projets. Que ce soit pour du web ou pour autre chose que du web, d'accord? Ensuite, il faut absolument arrêter les ventes et la promotion des ventes, et les promotions spéciales, le Black Friday, surtout si on n'est pas vendredi, enfin ce que vous voulez, tout ça il faut que ça gicle aussi. Absolument. C'est-à-dire qu'en gros, il vous reste un espace de promotion, c'est vos propres plateformes. Vous faites un truc, vous mettez 30% sur votre magasin, c'est votre droit. Si vous dites on déstock, on veut vendre, on fait des promotions, etc. Mais faire 50 000 newsletters autour, les machins, tout ce qui va autour, c'est pas la peine, ça sert à rien, il faut arrêter. Et si vous pensez que c'est de l'acquisition en plus, vous allez falsifier votre marché et vous allez dans la merde le jour où vous ne pourrez plus le faire. Conclusion, je l'ai dit au début, arrêtez les newsletters. Ça va piquer, ça va faire mal, ça va faire mal au chiffre d'affaires, il faut commencer par ça. Je vous dis encore une fois, si vous ne commencez pas par ça, un truc aussi facile que ça, à la base de ce truc-là, vous ne comprenez pas à quel point on va être dans la mer derrière, vous n'arriverez à rien. Vous vous condamnez dès demain. Et oui, c'est dégueulasse, il faut le faire à votre échelle pour tout le monde, tant pis. Communiquez-tu Dites à tout le monde, c'est la dernière newsletter, bravo, on arrête parce que c'est dégueulasse pour la planète. Ensuite, il faut changer vos habitudes internes. Ça veut dire, il est absolument impossible aujourd'hui et post-retour Covid et vaccinations, ce que vous voulez, de faire autre chose que du télétravail dans le monde du numérique. Tous les gens doivent travailler en télétravail. Vous n'avez aucune excuse pour que ce ne soit pas le cas. Vous allez pouvoir en inventer, mais c'est pas la peine de commencer par chercher comment contourner. Posez-vous plutôt la question de savoir comment le mettre en place. Vraiment. Et pas l'inverse. Ensuite, il vous faut des espaces, des bureaux qui soient, euh, si possible, éco-responsables. Ça veut dire au niveau des lumières, de la climatisation, de l'efficacité des bâtiments, la structure. Il ne faut pas prendre que des bureaux où vous pouvez rentrer les gens. Il faut prendre des bureaux où vous pouvez rentrer de l'honnêteté. Le but n'est pas de caler les gens à l'intérieur. Le but, c'est de caler de la responsabilité. D'accord Et ça passe devant les gens. Sinon, au bout d'un moment, de toute façon, vous n'aurez plus les gens à mettre dedans. Ça va être très simple à nouveau. Ensuite, il faut que les employés restent le plus possible au boulot pendant les pauses. Il faut les encourager. Pour ça, il ne faut pas les obliger. Ça veut dire qu'il faut aménager les choses pour que ça puisse être possible. Et il faut ensuite leur dire, si jamais vous avez besoin, on vous laisse ça. S'ils veulent dormir, il faut qu'ils puissent dormir. S'ils veulent bouffer, il faut qu'ils puissent bouffer. S'ils veulent aller dans un endroit, il faut être à un endroit où il y a des magasins ou quelque chose à côté. D'accord Je sais, ce n'est pas votre responsabilité, mais c'est vous qui choisissez où est-ce que vous travaillez. Ensuite, il ne faut pas du tout, mais alors du tout, du tout, du tout, engager des gens qui travaillent à distance, qui sont euh, à une certaine distance de chez vous. Si les gens sont trop loin, vous ne les prenez pas, point barre. Déménagez, foutez votre boîte ailleurs, C'est pas la peine de prendre des gens. Euh, moi, j'ai connu des personnes qui travaillaient dans certains milieux qui faisaient 130 km tous les jours pour aller au boulot. Il y a un moment donné, il faut arrêter le bullshit tout de suite. Il faut dire c'est terminé, c'est terminé. 130 bornes, c'est trop. 10 bornes, ça va. 30 bornes, c'est trop déjà. 30 bornes, il y a un problème. Si vous faites 30 bornes pour aller au boulot le matin, il faut arrêter Terminé, faire du télétravail. Vous pouvez dire à la limite, on fait du télétravail, on se voit un jour par quinzaine, un truc comme ça, c'est déjà beaucoup, hein. mais au moins, bon, ça va lisser un peu les coups, quoi. Parce que quelqu'un qui fait 30 bornes aller-retour une fois par quinzaine, c'est la même chose que, on va pas diviser, mais quelqu'un qui fait, euh, tout, on va dire cinq jours par semaine, qui va faire 6 km par jour. Donc il habite à 3 km du boulot, c'est pas mal en ce cas-là, c'est mieux. Mais il faut s'arranger là-dessus. Ensuite, il faut absolument que vous soyez responsable du fait que les gens puissent se garer autour de chez vous. S'ils passent leur temps à tourner avec leur véhicule pour se garer en étant à la bourre au boulot, le problème n'est pas qu'ils soient à la bourre au boulot, le problème c'est qu'ils aient mis du temps à se garer. C'est votre problème. Donc il faut vous démerder à ce que quelqu'un puisse le faire. S'il n'y a, a plus de place sur les parkings, etc., dites aux gens de foutre le camp, foutez-les chez eux, etc. Encore une autre raison de faire du télétravail. Ensuite. Essayez, si vous en avez vraiment besoin, de trouver des véhicules qui soient économiques et pas juste parce que le gouvernement file des aides dessus. Prenez des véhicules légers qui pèsent moins, c'est la meilleure manière d'économiser du pognon. Plus vos véhicules sont légers, plus ils seront économiques. Qui sont électriques, si l'électricité est à bas carbone, nucléaire, etc. Dans le monde, ça dépend où vous êtes. Et minimaliste, oui, ça sera le cas. Et si vous avez les parkings pour les charger, par exemple, s'ils si sont à charge, etc. Ensuite, supprimez tous les allers-retours, tous les voyages et oubliez définitivement les avions. Ensuite, revoyez vos process. Vous avez des process, c'est très bien, foutez-les à la poubelle. Le temps d'écrire les process, c'est de la consommation pour rien, le temps de les suivre, c'est encore pire. Faites au plus simple, d'accord S'il y a des choses dedans qui ne servent à rien, ne dites pas aux gens, t'avais qu'à le process, dis-leur, le process est pourri. Avec le « you ain't gonna need it okay », ok Ensuite, faites un bilan carbone pour vous-même. Deuxième chose, c'est pas le tout de le faire, faut le suivre. C'est des recommandations. Ensuite, faites la promotion des transports en public à l'intérieur de vos locaux et avec vos employés en disant je vous informe qu'il existe des trucs ça peut paraître con, même s'ils habitent dans la ville ils sont pas toujours au courant de tout, surtout s'ils sont venus habiter récemment dans la ville ensuite, incitez les gens à prendre des congés, non pas fixés à date annuelle parce que c'est écologique de les prendre tous en même temps, ça fait fermer les, les locaux etc, mais surtout pendant qu'il y a des conditions extrêmes s'il va neiger, faire une tornade et faire moins 25 fermez vos locaux s'il va faire une putain de canicule à 50 degrés, fermez vos locaux. Ne dites pas aux gens, venez travailler et dites, restez chez vous. Ça, c'est super responsable. Parce que vous allez consommer à mort pour leur permettre de travailler. Ensuite... Euh, quand il y a des événements humains, ça m'est arrivé récemment, qu'il y a des, des salons, des fêtes, des machins, etc., qui vont boucher le passage, empêcher d'accéder à vos locaux, etc., autour de vous, fermez votre agence. Ne dites plus, venez là, faites du télétravail. Si ce vendredi-là, il y a un salon, machin, qui bouge, qui bouge toute la ville autour de chez vous, que c'est le, le carnaval ou ce que vous voulez, stop, les gens ne viennent pas chez vous. Dites-leur juste, restez aujourd'hui, prenez un après-midi, j'en sais rien, ne, ne venez pas. Euh, si ça dure trois jours, ça dure trois jours, huit jours, ça dure huit jours, peu importe. C'est votre problème, c'est pas leur problème, c'est votre problème à vous. Et vous n'êtes pas responsable si vous n'incitez pas les gens à ne pas venir. Ensuite, euh, bah tout simplement, arrêtez de faire rassembler les gens en dehors des horaires du boulot. Ne rajoutez pas encore plus d'horaires en disant tout le monde va reprendre son véhicule, reprendre ses voitures, etc., pour aller bouffer au resto, à votre énième soirée d'agence dont on se fout. Ça sert absolument à rien. Ça part d'un très bon sentiment, c'est pas la question, c'est une horreur, ce truc-là, pour lui. Donc, n'allez pas inventer ces trucs-là, arrêtez de le faire. Faites-le à minima pendant vos horaires de boulot, démerdez-vous, c'est votre problème. Euh, n'allez pas plus loin, faites un résumé par mail, par une communication publique sur votre réseau social d'entreprise, etc. Trouvez d'autres moyens. Trouvez d'autres moyens, amenez tout le monde en soirée ou je sais pas où, euh, faire une activité à côté, c'est vraiment une horreur. Et ça ne vous rend pas forcément beaucoup plus sympathique. On voit bien que c'est du maquillage d'entreprise. Sans être méchant, personne ne le critique en soi. C'est pas critiquable. Ça part d'une vraie bonne intention, mais ça part aussi d'une intention de productivité. Donc ce truc-là, c'est de la pollution gratuite. Et oui, c'est pas drôle. Et oui, c'est pas cool. Et on l'a dit depuis le début. Tout ce qui a supprimé, il a jamais été dit que ça serait facile et drôle. Il y a quelques trucs qu'on peut arrêter de faire dans le monde qui sont faciles et drôles. Euh, par exemple, limiter les trajets, ça c'est cool. Si vraiment plus personne aujourd'hui n'a de trajet au boulot, les gens vont être contents. Mais il n'y a pas tout qui est drôle. Donc ça, ça fait partie des trucs pas drôles. Il faut l'enlever. Voilà. Ensuite, euh, il faut euh, supprimer le plus possible euh, de données, euh, de data, enfin de le marché de la data. Il faut l'utiliser uniquement pour vos marges, il ne faut pas l'utiliser euh, pour gérer votre turnover ou pour savoir ce que vous allez faire avec vos employés. Utilisez le marché de la donnée, l'intelligence de la donnée pour votre métier, pour analyser plutôt vos clients que pour analyser les personnes qui travaillent avec vous. Ensuite, vous devez absolument acheter et louer des ordinateurs meilleurs, c'est-à-dire de meilleure qualité, plus cher, et oui, ça vaut le coup, et pour une durée plus longue. Si l'écran n'est pas plus grand en général, le processeur coûte plus cher, mais c'est juste parce qu'il est plus puissant, il n'est pas beaucoup plus cher à fabriquer. Donc prenez des ordinateurs qui vont tenir plus longtemps, parce qu'ils mettront moins de temps à être épuisés et d'être lents. Ils mettront moins de temps avant que l'humain qui les utilise ne perçoive la lenteur de la machine. Vous voyez Ça, c'est super important. Prenez des bonnes marques, prenez des trucs qui durent, regardez sur le net combien de temps elles sont validées, si les, le, le temps moyen de location, etc., etc., etc. Regardez combien de temps elles sont assurées, faites attention à ça. Demandez des garanties et des assurances plus longues sur le matériel que vous louez, que vous achetez. Faites attention aussi à la rotation et la réutilisation du matériel. Vous devez refourguer vos ordinateurs. Si jamais quelqu'un a des besoins moindres, vous devez pouvoir prendre des ordinateurs qui étaient faits pour les power users, mais qui sont âgés, les recycler, les réinstaller, les remettre à frais et les donner à des gens qui, par exemple, ne font que de la compta, c'est-à-dire du Word, du Excel toute la journée. Tant qu'ils ne crament pas, c'est parfait. Donc voilà, redispatchez-les en fonction des utilisateurs et de leurs besoins. Idem pour les smartphones, faites attention à ne pas enfiler à tout le monde et faites attention à prendre des smartphones qui soient, euh, d'un point de vue écologique, relativement réglo. Ensuite, n'utilisez plus de papier qui ne soit pas recyclé, surtout pour en un document interne, vous allez juste exiger une signature et imprimer une putain de feuille à 4 pour avoir 3 cm où il y a marqué signature, que personne ne va lire, que personne ne va regarder, qui va être rangé dans un coin, dans un beau placard, pour juste dire on se protège légalement. Ça n'a aucun intérêt. Ensuite. Essayez de voir si vous pouvez participer à des projets de conservation des arbres, etc. Personne ne vous demandera jamais rien là-dessus et je vous jure qu'en plus, il y en a plein qui sont vrais. C'est pas une blague, ça existe vraiment. Ensuite, changez vos solutions. Euh, essayez de ne pas adopter des, du matériel de bureau, des fournitures de bureau, des tables qui soient trop pourries ou trop fragiles. En gros, euh, dégage Ikea. Il y a des trucs Ikea très bien, mais euh, si vous avez des matériels de bureau, une vraie chaise, un vrai fauteuil de bureau, euh, moi je leur explique aux gens, ça s'organise, ça s'organise avec la médecine du travail, choses comme ça, ça vaut plusieurs centaines d'euros. Et c'est un truc que vous allez garder 10-15 ans, c'est pas un truc qui est pourri 3 ans plus tard. Ça, c'est plus important. Euh, ensuite. N'utilisez pas euh, le nouveau matériel pour faire la promotion de votre boîte. N'allez pas envoyer à vos commerciaux tous les ans, tous les six mois, le dernier iPhone pour leur faire plaisir et pour dire juste, euh, essayez de paraître euh, comme si on était super moderne. Non, c'est l'inverse. Aujourd'hui, vous dites non, mais ben non, c'est le même depuis trois ans. On le garde parce que c'est plus écologique. Les gens vont dire, ah ouais, je pas vu comme ça. Ça, c'est intelligent. Vous allez présenter, plutôt que vos signes extérieurs de richesse et de pollution, des signes extérieurs d'intelligence, ce qui est quand même vachement plus intéressant. À condition, évidemment, que les personnes le comprennent. Euh, foutez du Wi-Fi partout, c'est-à-dire que les réseaux 3G, 4G, 5G faut arrêter. C'est vraiment beaucoup beaucoup plus consommateur de pollution les réseaux 3G, 4G, 5G que le Wi-Fi. Donc tant qu'il y a du réseau local, toute l'activité de votre smartphone, hors SMS et hors appel téléphonique, va passer par le Wi-Fi. Et ça, c'est super important. À commencer par chez vous. Il est impensable d'habiter chez soi et d'être en 4G, 5G avec une tablette ou un smartphone. C'est pas possible. On est en 2021, ce n'est pas possible. Vous avez du Wi-Fi chez vous et votre smartphone se connecte tout seul dessus. Ensuite, essayez d'avoir de la gestion du, on va dire, du climat intérieur, de, du conditionnement de l'air euh, automatisable, programmé, intelligente, que ce soit le chauffage ou la clim. Euh, et si possible, pas de clim, c'est pas mal aussi. Ne mettez pas des températures délirantes aussi dans vos, dans vos, dans vos logements. S'ils ont bien été choisis, normalement, il y a besoin de chauffage. en fait. S'ils sont, par exemple, neutres écologiquement, vous allez voir les factures de chauffage, elles vont plus exister. C'est marrant. Euh... Je ne savais pas. Juste les gens dedans, plus les, les, les ordinateurs qui chauffent, tout ça, ça suffira largement à chauffer l'intérieur. Ensuite, pour l'hébergement de vos données, euh, les serveurs, les, 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 les offres d'hébergement, prenez des hébergeurs qui sont responsables et qui ne font pas n'importe quoi. On a vu tout à l'heure, Greenpeace peut vous aider. Utilisez aussi de la domotique pour optimiser vos prises, pour optimiser vos, vos utilisations d'appareils, etc. Il y a moyen de faire beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite. Vous devez absolument mettre à jour tous les logiciels tout le temps. C'est pas une mode, c'est pas pour faire joli, c'est pas que pour la sécurité. C'est parce que vraiment, le logiciel, normalement, consomme moins en corrigeant beaucoup de pages derrière. Par contre, en même temps, il rajoute beaucoup de fonctionnalités. Donc, du coup, ils vont conduire plus. Ensuite, vous devez trouver des points de, 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 de dépôt pour la fin de vie de vos appareillages électroniques. Vous devez définir euh, une utilisation. Euh, correcte et décente de vos applications et de ce que vous fabriquez. Vous devez informer les gens des conséquences du fait d'utiliser votre application. Vous devez leur dire nous existons, nous polluons, voilà ce que nous faisons. Ça se fait de plus en plus et c'est une très bonne idée. Ensuite, il faut juste, mais alors tout de suite, arrêter d'acheter des goodies pour faire la promotion de votre société, en interne ou en externe. C'est terminé. Les selles que vous pouvez utiliser, par exemple, c'est les gourdes avec le, la, le nom de la boîte. Euh, Pour ce que ça c'est utile, ça évite de prendre des verres et des gobelets. Mais enfin attention, une fois que les gens en ont, c'est pas la peine, ils en ont une quoi. Voilà. Et des gourdes, c'est en verre, c'est pas en plastique. Hein. D'accord. Donc ça c'est un truc super important. Ensuite, c'est pas la peine de passer vos vies à faire des questionnaires de satisfaction, etc. Et demander aux gens leurs avis. Avez-vous été content? Oui, non. Smile haut, hauts, smile bas. Ça c'est de la pollution gratuite et de la data qui sert à rien. Vraiment, peu importe ce que vous pensez, c'est la data qui sert à rien, il faut arrêter ça aussi. Ça fait longtemps qu'on a arrêté ces trucs-là. Vous aurez d'autres moyens de vous rendre compte de ce que font les gens derrière. Euh, mettez des formulaires de contact, que les gens vous contactent s'ils ont besoin de vous dire un truc. Le jour où ils auront besoin de vous dire un truc, vous inquiétez pas, ils viendront vous le dire. Ensuite... Euh, il faut arrêter de faire des paris sur la finance et de dire comment on va faire pour financer les projets et de dire on va dégager tant de budget et on ne dépassera pas. Votre budget n'est pas déterminé par vos besoins. Euh, le be enfin, pour être exact, c'est le besoin qui va déterminer le budget, ce n'est pas le budget qui a déterminer le besoin. Surtout qu'en plus, en général, dans toutes les structures aujourd'hui, le besoin, c'est une personne et un service, le budget est d'un côté et le besoin euh, est de l'autre côté avec d'autres personnes derrière. Donc en général, elles ne se parlent pas, ces gens-là, et elles ne se justifient pas les choses de l'une à l'autre. Donc en gros, très souvent, quand on est un individu en particulier, on se dit tiens j'aimerais bien avoir une Porsche, mais je gagne un SMIC et demi. et bien les sociétés, c'est pareil, elles ont des revenus qui sont équivalents à ça, à X, et elles demandent des projets qui valent 3 fois X. Et tu dis bah non, tu peux pas te le payer. Seulement le problème, c'est que c'est très dur à voir pour un projet à plusieurs millions d'euros, plusieurs centaines milliers d'euros. Donc maintenant, vous dites, on commence à faire le truc, on fait le projet, vous le voulez vraiment, on a estimé le besoin écologique, etc. Vous le voulez vraiment, 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 ok. On le fait, on commence demain, voilà l'équipe, on attaque. Et le jour où ça se fait, on commence à en parler et on verra au fur et à mesure combien ça coûte et quand vous en avez marre de payer, vous arrêtez de payer. Mais on ne décide pas d'avance de savoir qui va surconsommer, qui va survendre, qui va faire de la suractivité, qui va générer du stress, de l'angoisse ou de la non-préparation et qui va devoir produire donc un peu plus de pollution pour le monde. En gros, les coûts opérationnels sont bien moins polluants que les coûts qui sont basés sur le... le, le le capital expenditure, c'est-à-dire en gros la, la préparation à l'avance de vos, de vos finances. En disant, on met tant de pognon et ça sera payé quoi qu'il arrive. Euh, dit autrement, si vous êtes en France, dans l'informatique, le forfait, euh, c'est de la merde. Voilà. Donc vous n'avez plus le choix, vraiment. Si vous voulez être écologique, il faut arrêter ça. Parce que c'est trop d'échanges, c'est trop de pollution, c'est trop d'emails, c'est trop de trucs envoyés, c'est trop de déplacements, c'est trop de négociations, c'est trop de choses et c'est trop de pertes pour le fonctionnement, c'est trop d'overhead, de surcharge, de contractualisation, c'est trop de courriers, d'échanges de satisfaction, de réunions de crise, etc. Pour rien. C'est absolument trop pour rien. Il n'y a plus aucune structure aujourd'hui qui peut se justifier d'un engagement forfaitaire sur ce qu'elle fait. Quand vous produisez des produits physiques, matériels, avec du très grand public par des millions de choses, vous pouvez faire du forfait, comme pour un opérateur téléphonique, parce que là, ça a du sens. Les coûts à mutualiser à échelle individuelle sont beaucoup trop grands. Quand vous avez une société et un prestataire, donc un commanditaire, un prestataire, il n'y a pas un million de personnes, il y a deux entités, point. Donc dans ce cas-là, vous passez et vous restez en euh, coût opérationnel, absolument. Ensuite, une fois que vous avez compris tout ça, il ne faut pas rester tout seul dans votre coin. Il faut absolument convaincre vos clients et vos partenaires de se dégager du marketing eux-mêmes qui sert à rien la plupart du temps. Et ça, ça fait très mal. Rappelez-vous, pour la première fois, la présidentielle 2022, il va y avoir des partis politiques qui vont mettre dans leur programme, en tout cas, je n'avais jamais vu avant, euh, il y en a peut je n'ai peut-être pas eu passer, qui commencent à dire il va falloir supprimer la publicité. Il y a des gens qui commencent très sérieusement à dire on n'a plus le choix, il va falloir couper quelque part, et la concurrence et la publicité, ça va commencer à faire mal. Donc, en gros, par exemple, vous allez probablement croître plus en rachetant des sociétés qu'en essayant d'augmenter le, le bénéfice, la marge nette euh, de la vôtre. Pur, euh, simplement, par, par, par coût interne. D'accord Donc. Essayez aussi euh, d'être un peu en termes euh, d'évangélisation, de diffusion au niveau de euh, ce qui est la suppression des données tierces, euh, que ce soit du Google Analytics ou ce que vous voulez derrière, mais faites attention, ça au-delà de la GDPR. Donner le mot aux autres, moi j'ai essayé de faire faire à des clients cette année, de leur faire prendre conscience de ça, euh, de leur faire retirer un max possible de tracking, de leur faire revoir la, la manière avec laquelle ils allaient publier des choses. Et on était parti à mettre plein de trucs au début, finalement on en a mis moitié moins. Alors c'était une demi-victoire. La prochaine victoire c'est de leur les convaincre qu'en fait il n'en faut absolument pas. Tout ce qu'ils font marche absolument très bien sans aucun tracker, sans aucune donnée tiers, sans revente de données. Et leur business s'emportera tout le temps. Donc voilà. Euh, N'essayez pas d'avoir comme modèle économique, ça c'est plus dur, de créer la dépendance des gens pour vos écosystèmes. Ça veut dire y compris pour le e-commerce. Ne poussez pas les gens à suracheter. Parce que le jour où ils n'auront plus l'argent pour suracheter, vous allez être les premiers à vous dire merde, on avait basé sur 30% de croissance, à la place on a 30% de perte. Et là ça va faire mal parce que vous allez revenir à un modèle économique normal. Avec une intensité, une activité économique normale que vous aviez volontairement gonflée et vous, vous étiez dit personne va le voir. Et au bout d'un moment, vous allez le voir et vous allez prendre ça dans les dents et ça va coûter plus cher encore que la simple perte économique brute. Parce que gérer des pertes, ça coûte cher. Oui. Ensuite, euh, essayez de construire une expertise numérique euh, de la pollution, de l'écologie avec votre staff. Ne restez pas en arrière à attendre que tout le monde le fasse pour vous. Faites des meetings internes sur les sujets écologiques. Euh, monitorer, surveiller tous les impacts écologiques de la numérisation chez vous, partager votre expertise avec vos partenaires et essayez de prendre autant que ce feu de l'open source au niveau du software et du hardware, ça existe aussi. En gros, tout ça n'est pas pour dire ça va contre vos profits. Par contre, si personne n'arrive à faire le moindre effort, ça va être contre les profits de tout le monde à la fois. Et c'est ça qui est la clé à comprendre dans un secteur où on a vendu de la concurrence et une économie de marché à tout le monde. Bon courage pour arriver à réguler ça. En fait, parce que la data et le, la hype autour de l'intelligence artificielle sont vraiment déjà un truc de boomer. Hein. Je sais, c'était l'année dernière, mais c'est à cette vitesse-là que ça va. On est déjà en train, pour moi en tout cas, de migrer sur quelque chose de plus critique, de nouveau, un, quelque chose de, en tout cas de plus critique pour votre business. On va sur une éco-conception et l'éco-conception être écologiquement avancée. Euh, et d'une nouvelle manière de dire, en fait, on est les meilleurs en 2021. Si aujourd'hui, vous arrivez à concevoir des choses écologiques, ça va super bien marcher. Et pour finir, la dernière solution en tant que travailleur du numérique, euh, et après promis, on arrête. Euh, D'abord, votre mot-clé, c'est l'éco-conception qui passe par trois, trois aspects. Euh, le LCA, le Product Life Cycle Assessment, c'est-à-dire en gros le, le, la lecture du cycle de vie. De votre, de votre produit, de sa fabrication, la distribution, l'installation, l'utilisation, la fin de vie. Considérez le, le comportement économique, euh, considérez les parties prenantes dessus et tout ce qui va pouvoir être lié à votre logiciel. Ensuite, vous, vous concentrez sur les fonctionnalités, l'utilisation, le niveau de performance et la durabilité. Ensuite, vous devez mesurer les indicateurs de performance environnementale liés au produit, au service les ressources naturelles utilisées, l'eau consommée, la génération, etc. de déchets, euh, en étant sûr qu'il n'y a pas de transfert de pollution. Je vous ai dit, le but, c'est pas d'arriver à euh, passer d'un système à l'autre. Si vous consommez moins d'eau pour faire un système, parce que vous utilisez des data centers qui refroidissent moins les trucs, etc., mais que derrière vous générez plus de déchets solides, ben, vous n'avez rien gagné. La pollution elle reste toujours la même. Vous avez fait que transférer et vous mettre de la poudre aux yeux. Ça, ça va pour tous les travailleurs du digital, travailleuses du digital. Ensuite, il faut apprendre à faire des euh, solutions qui coûtent moins. Donc d'abord, il faut essayer de faire du downscaling, ça veut dire votre application, tant qu'elle n'est pas utilisée, elle ne devrait pas consommer. Pour ça, le top aujourd'hui, normalement, c'est d'arriver à faire du serverless. Si vous arrivez à maîtriser ça et que c'est possible et applicable pour votre application, et qu'effectivement c'est rentable, vous devriez avoir des coûts, mais vous, mais aussi l'hébergeur qui sont considérablement, euh, considérablement réduits. D'accord le serveur, voilà, je le rappelle, c'est vous faites tourner le CPU et la RAM au dernier moment. Il n'y a que l'espace disque qui reste sans bouger le reste du temps. d'accord Apprenez ce que c'est que le caching. J'ai fait une conférence de 4 heures là-dessus. Vous n'avez pas le droit de ne pas savoir, surtout sur le web. Euh, essayez de réduire la complexité des systèmes d'information. Ça veut dire que vous devez les concevoir plus simples. Ça veut dire que vous devez demander moins de choses aux gens. Moins de, moins de boutons, moins de saisies, moins de calculs. Tout ce que vous pouvez faire, c'est du gain pour la planète. Ensuite. Utiliser euh, de performance monitoring et du profilage pour dire en gros ok on a fait l'application ok elle fonctionne elle correspond aux besoins de ce qui était exprimé mais est-ce qu'elle est vraiment bien partout et au bout d'un moment vous allez vous rendre compte qu'en regardant dedans vous allez être pris par un démon celui de l'optimisation et le démon de l'optimisation c'est beaucoup beaucoup de temps gagné et au passage si vous voulez le justifier le temps gagné c'est du temps de chargement en moins et c'est du temps d'attention en plus donc c'est du pognon en plus puisque ça a été prouvé depuis longtemps que plus les gens attendent moins ils consomment sur vos systèmes Ensuite, vérifiez euh, la gourmandise de vos algorithmes et la propension qu'ils ont à euh, défoncer vos machines. N'oubliez pas de regarder aussi la même chose pour les bases de données et la sur notamment le fait d'avoir sur-rationalisé euh, et euh, mis en relation les éléments ou les entités en base, ça va très très vite. J'en ai eu des exemples encore cet été. Ensuite, essayez d'éviter les cookies et les sessions. La plupart du temps, si vous n'avez rien à stocker, s'il n'y a pas besoin de session, c'est pas la peine de la démarrer sans raison. Les gens devraient pouvoir se balader sur votre site sans jamais avoir de cookies. Ensuite, essayer d'utiliser la compression au niveau de transfert, donc ça consomme un peu de CPU, mais au niveau du réseau on s'y retrouve. Donc les entêtes, les, le contenu zippé dans tous les, dans tous les échanges, hein, d'API à API, de, de web à web, de non-web à non-web, de microservice à microservice, ça vaut toujours le coup. Ensuite, préférez euh, autant que faire se peut. Le, euh, le tracking, c'est-à-dire le suivi des données euh, et du comportement utilisateur, si vraiment vous voulez en faire, chez vous, dans vos infrastructures, plutôt que par du cloud. Je ne vais pas vous donner le nom des euh, logiciels qui vont derrière ça, mais vous avez très bien compris ce que je veux dire. N'allez pas chercher le, le ciblage des personnes et le, le profilage des utilisateurs par le biais d'un service tiers. Faites-le vous-même. Il y a des services qui se font, qui s'hébergent là-dessus, qui le font pour eux, et vous aurez peut-être besoin de deux ou trois applications, mais ce sera toujours mieux. Par contre, préférez vraiment, vraiment l'hébergement le, le, sur du cloud à très large échelle, euh, pas le vôtre, celui du fournisseur, euh, parce qu'en fait, s'ils ont des bonnes notes au niveau écologique, vous n'arriverez jamais, jamais à l'optimisation de leurs coûts et d'écologie comme ils le font. Pour le dire simplement, vous n'arriverez jamais avec vos serveurs à vous à être aussi propres et écolo que Amazon, Google, Facebook. Point. C'est tout. C'est aussi bête que ça ou Microsoft. Vous n'y arriverez pas. Donc, en gros. Il y a beaucoup de raisons pour ne pas aller chez eux, et il y a beaucoup de raisons pour y aller. Donc, jugez bien de tous ces éléments-là quand vous choisissez. Ensuite, compressez vos assets. Euh, si c'est pour du web, TinyPNG, Webpack, ça fait tout ça, y compris les vidéos, ça se compresse très bien les vidéos aussi. Euh, utilisez des objets vectoriels, c'est pas la peine de faire votre logo en euh, GIF dégueulasse ou en PNG énorme. On peut le faire en SVG, ça prend trois lignes et ça consomme dix fois moins de place. Les PDF, c'est pareil, c'est vachement bien, faire beaucoup de choses, tout est vectoriel dedans. Et le poids du PDF va représenter beaucoup moins de place. Au passage, dans les PDF, on peut aussi mettre des éléments vectoriels. Il n'y a pas que le texte, les images peuvent être aussi vectorielles. Vous pouvez charger les assets uniquement au moment où elles sont appelées. Si c'est du web par exemple, il faut scroller sur les pages et ça charge les images à ce moment-là. Si c'est pas du web, ça peut marcher aussi. C'est facile à faire et c'est quand même encore plus facile à faire que ça. Vous devriez définitivement supprimer et virer tout le code mort et le code commenté. Même s'il n'est pas exécuté, c'est de la place pour rien stocker sur les disques. N'utilisez pas non plus l'autocomplétion à outrance, l'autocomplétion c'est de la pollution, ça sert à rien de la mettre, virez-la. Ensuite, euh, essayez de maximiser le, le service statique euh, plutôt que le service dynamique. Par exemple, les fichiers générés. Euh, si vous générez des factures, des PDF, n'importe quoi dessus, des documents officiels. Normalement, si les entrées ne changent pas, donc ce qu'on appelle idempotent, si les entrées ne changent pas, la sortie ne change pas. Donc, c'est pas la peine de régénérer les PDF de facture ou de bilan comptable ou je ne sais quoi, à chaque fois qu'on les appelle. Stockez-les et mettez celui qui est en cache. Si jamais un jour il y a un problème et qu'il n'est plus à jour, prévoyez de faire régénérer, par exemple, dessus. Ensuite, euh, essayez d'avoir, et là c'est plus dur, des allumages et des extinctions de serveurs automatiques. Ça c'est plus dur. Si par exemple vous avez du B2B et que votre clientèle se connecte exclusivement de 7h du matin à 22h le soir et que vous n'avez plus aucune connexion derrière, finissez de le forcer. Vous dites attention, le service est coupé après 22h. Et derrière, vous prévoyez que vos machines s'éteignent. Ça peut paraître dingue, on sait le faire ça aujourd'hui. On peut faire ça. Ce n'est pas une technologie de dingue, on sait faire ça. Ensuite, euh, essayez d'avoir des versions éco-responsables de votre site. Vous voulez une version super éco responsable, regardez la page d'accueil de google.com, elle est incroyable, elle ne pèse rien, parce que ça coûte très cher. Il y a des, plein de sites, le, il y a l'équivalent de la SNCF en Allemagne qui a fait ça. Et vous avez euh, que du web des années 90, ça fonctionne hyper bien, les gens se retrouvent pareil, ils s'en foutent. Vous pouvez même vous pouvez mettre un minimum de décoration, mais faut faut-on, c'est minimum. Et euh, ça charge beaucoup plus vite, ça bouffe beaucoup moins de place et ça vraiment c'est une tuerie au niveau du chargement. Ça va beaucoup plus vite. Donc voilà, mettez à jour les frameworks, les bibliothèques, les langages, tout ça, ça vaut le coup. Enlevez toutes les fonctionnalités qui sont en trop. Pensez aussi à ça, c'est-à-dire si vous avez une équipe d'intégration continue avec du, du logiciel en développement continu, des méthodes agiles, etc. Euh, surtout, mettez-vous de dire est-ce qu'on utilise encore ça Prévoir de le virer. Et c'est devenu quelque chose de primordial. C'est pas un truc qu'on va repousser 25 fois. Il n'y a pas que le nouveau, il faut aussi virer l'ancien. Donc voilà, faites attention aux gens qui vont faire du CV Driven Development et aux gens qui vont commencer à mettre des technologies juste parce qu'ils ont envie que ça apparaisse sur leur CV. En général, ils vont coûter plus cher mais plus de temps et si c'est n'est pas validé par tout le monde, c'est une mauvaise idée. Évidemment, je ne reviens pas là-dessus. Si vous faites pas du développement agile et j'ai bien dit du développement logiciel agile, je n'ai pas dit un RZ, je n'ai pas du Agile Innémonly ou Scrum in only, ce que vous voulez. Tout ça, c'est du bullshit. Si vous ne faites pas du vrai développement agile où vos équipes choisissent ce qu'elles vont faire et disent nous on va faire ça et ça sera prêt dans 15 jours ou dans 8 jours ou dans 3 semaines ou ce que vous voulez, si vous ne faites pas de développement agile. Ne cherchez pas à dire si si on en fait, c'est marqué sur l'étiquette. Je vais vous filez un bocal de merde avec marqué une étiquette dessus, cerise, je vous garantis qu'en les mangeant, ce ne sera pas des cerises, d'accord euh, ça dépendra de ce que j'ai mangé. Mais voilà, non, ne faites pas ça. L'étiquette ne correspond pas au produit. Ne vous, ne vous prenez pas vous-même pour des fous. Ne vous trompez pas vous-même. Ça ne sert à rien. Ça n'apporte rien. Ça fait consommer tout le monde. Ensuite, euh, n'insérez pas de contenu riche quand vous n'en avez pas besoin. N'allez pas mettre des tonnes de pages avec des tonnes de choses dessus, de l'animation, des vidéos, machin, etc. Si ça n'apporte absolument rien. Pensez au final... Euh -E SS c'est-à-dire responsive web design plus server size, euh, et plutôt et la, la modulation et des composants plutôt que euh, de vous plonger sur un truc full responsive. Ça veut dire que au lieu de dire euh, à l'appareil final, donc au smartphone, etc. pour le web, encore une fois, voilà tout ce qu'il te faut pour afficher et trier ce que tu veux. Donc beaucoup de gras, beaucoup de trucs en plus. Dites-vous juste. Voilà, le, le, le smartphone m'a dit qui il était. Je lui renvoie ce dont il a besoin et pas plus. Et comme ça, après, ça devrait fonctionner. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire, regardez euh, www.facebook.com et m.facebook.com. Vous avez deux versions différentes pour le même site qui sont un exemple parfait de RESS. Si vous pensez que Facebook sont des petits et des nuls, allez leur dire. Ok Donc, ensuite, euh, n'allez surtout pas, surtout, surtout pas. Foutre des notifications parce que c'est la mode partout. Ne mettez pas de pop-in intrusif pour les newsletters ou pour voulez-vous recevoir les modifications, les notifications de ça Les gens s'en foutent complètement. Laissez un gros bouton dans un coin pour dire activer les notifications ils seront plus heureux avec ça. Et ça vaut en plus pour la GDPR. Ensuite, n'utilisez pas lecture automatique des vidéos, tout ça, les images, les gifs animés, tout ça, il ne faut pas les lire. Ça ne sert à rien. Lisez-les quand les gens cliquent dessus. Mais soyez sûr en plus que vous utilisez des standards et des solutions ouvertes, que ce soit pour les câbles, les protocoles, etc. Et pas les trucs qui vont périmer, qui justifieront une refonte juste parce que plus personne ne l'utilise. Essayez d'avoir des métriques écologiques dans vos devis. Ça veut dire que quand vous allez faire des devis, si vous dites attention, ça va coûter cher à la planète, vous dites qu'il y a une charge de plus. Et peu importe ce que les gens pensent, vous dites c'est notre prix, ça fait partie de la charge. D'accord Ensuite, n'utilisez pas pour le web, ça c'est un petit détail, des single page applications pour des sites web légers qui n'ont même pas 10 pages vues par visite. Ça ne sert absolument à rien. Ça ne sert que quand les gens restent très longtemps et très souvent sur le même site. Non, ne rêvez pas. Les gens ne vont pas rester très longtemps et très souvent sur votre site. Ils s'en foutent. Ils vont venir une fois de temps en temps, c'est tout. Ensuite, n'utilisez pas des frameworks super gros pour des toutes petites applications. Apprenez qu'il y a autre chose dans la vie et vous en sortirez beaucoup mieux. Et surtout, vérifiez bien deux fois, à chaque fois que vous allez implémenter quelque chose, la comparaison entre l'utilisation et les besoins de chaque action que vous allez faire. Si vous vous demandez comment on fait pour réviser tout ça, constituez des équipes qui vont essayer de récupérer des données <coughs> sur le CPU, la RAM, l'utilisation réseau, les visites, qui vont croiser les datas avec euh, le nombre d'appels, d'impressions <coughs> sur le web, etc. Ensuite, essayez de regarder quels sont vos référentiels, euh, structurez vos rapports, vos calculs, votre méthodologie, et regardez comment les autres font pour estimer leurs coûts, leur empreinte écologique. Vous allez avoir beaucoup de métriques différentes, de plein de fournisseurs de données différents, des machines locales, des employés de serveurs, des fournisseurs d'accès, de cloud computing, etc. Euh, vos rapports de factures énergétiques, etc. Euh, soyez juste conscient que les coûts financiers ne reflètent pas les coûts carbone et l'empreinte écologique. Donc tout va devoir être un gros challenge pour mesurer votre empreinte carbone. Au niveau des normes, vous avez les normes ISO 14064 qui sont devenues un standard international pour la, de référence pour ce qui concerne les gaz à effet de serre. Euh, ça a été créé pour standardiser les, les, les pratiques et euh, certifier les résultats. Donc ça peut être euh, construit... Euh, en termes, en, en termes de méthodologie de comptabilité carbone euh, à partir de ces, de ces méthodes-là. Et oui, ça peut être certifié aussi. Donc, vous pouvez par exemple être certifié ISO 1464. Euh, le bilan carbone qui vient de la comptabilité carbone euh, est en accord avec ISO 1464. Euh, ça a été mis en place par l'Agence française euh, des transitions écologiques, l'ADEME. Euh, et le protocole de gaz à effet de serre a été créé par le World Resources Institute, le WRI et par le euh, World Business Council for Sustainable Development. Et le protocole GHG euh, fonctionne avec des, des organisations non gouvernementales et des gouvernements pour essayer de construire une espèce de méthodologie de comptabilité efficace sur le carbone. Euh, et euh, au passage, si ça vous intéresse, Microsoft a commencé à mettre un calculateur carbone pour les applications en ligne qui évidemment euh, tourne sur BI Pro dont il faut une licence. Peu importe qui vous êtes, trouvez-vous des alliés dans le secteur digital, euh, ne soyez pas tout seul. Vous devez commencer quelque chose et vous ne savez pas où aller, n'oubliez jamais que rien du tout, c'est ce qu'on faisait jusque là. Donc la bonne nouvelle c'est que vous ne pouvez pas faire pire que ce qu'on faisait jusque là, à moins de je sais pas, commencer à utiliser des serveurs basés sur du pétrole, ou utiliser le charbon pour réchauffer votre bureau, euh, je pense que peu de monde va apprécier ce genre d'initiative, donc normalement vous ne ferez pas pire que ce que vous faisiez jusque là. Et comme on l'a vu à la fin, où ils pas être en, en, en faveur euh, d'une suppression du vieux monde et euh, le faire tourner en même temps. Euh, certains d'entre nous, si c'est pas tous, tous les gens d'entre nous, vont devoir faire des choix. Et toutes et tous, individuellement et collectivement, on va devoir faire des choix. Et un dernier truc en tant que responsable et travailleur du numérique l'accessibilité et la qualité vont souvent. Très souvent rimé avec l'éco-conception. Ce pas une blague. Essayez de trouver des, référent, des référentiels d'accessibilité pour la qualité, etc. Si vous faites du web, vous avez les recommandations opcas qui sont absolument obligatoires. Pour parler d'éco-conception, de, de, il y a euh, en français euh, un bouquin qui s'appelle Éco-conception web les 115 bonnes pratiques. Euh, oui, c'est en français uniquement, mais ça, vous trouverez quand même. Euh, et si vous voulez commencer à s'aimer sur l'écologie euh, de l'IT, euh, vous avez des trucs comme la Green IT Alliance et des trucs qui se forment petit à petit. Euh, les gens commencent à se rassembler, c'est de trouver des référentiels communs. N'oubliez pas que le programme Energy Star, que vous voyez au début des cartes mères et tout ça, il est né en 1992. C'est vous dire si on n'est pas totalement nouveau dans le secteur là-dessus. Je vais finir enfin avec quelques mots plus légers. Euh, pour apaiser un peu euh, et vous quitter sur une note plus positive. Euh, J'aime bien cette petite partie d'un poème anglais qu'Alfred Lord Tennyson a écrit un jour, que vous pouvez éventuellement avoir déjà vu quelque part, dont vous pouvez vous rappeler, parce que c'est dans une des meilleures scènes, d'un des meilleurs James Bond jamais fait. Euh, et si vous savez d'où, je vous aime par avance. <laughs> c'est une petite part d'un poème qui définit ce que c'est que la motivation, la résilience sans fatalité, euh, à propos de comment y faire face et de ce qu'on a fait dans le passé. Si je le traduis grosso modo, ça voudrait dire « Bien que beaucoup soient pris, beaucoup demeurent, et que nous ne soyons plus cette force qui autrefois avait terre et ciel remué, ce que nous sommes, nous sommes un tempérament égal de cœur héroïques rendu faible par le temps et le destin, mais fort d'une volonté de s'efforcer, chercher, trouver et de ne pas céder. » Si vous regardez à cette, cette image, si vous regardez... Euh, vous allez voir là-dessus, en fait, ce, cette photo, les vrais Avengers. Et à Tony Stark, au milieu, ici, évidemment. Euh, sauf que c'est vraiment des gens qui ont existé sur cette image et qui ont posé les fondations de bon nombre de choses qu'on sait aujourd'hui. Euh, Einstein, Curie, euh, Schrödinger, Planck, euh, Henriot, Pauli, Heisenberg, Bohr, Lorenz, Langevin. Tellement de noms absolument incroyable, et encore il en manque sur la photo. Ces gens-là étaient complètement en avance sur leur temps. Je ne sais pas s'il y a une place aujourd'hui dans notre monde pour les nouveaux Avengers, mais j'ai déjà quelques idées de deux ou trois personnes qu'on pourrait mettre sur une liste pour faire une photo de ce genre-là aujourd'hui. Et je ne suis même pas sûr de savoir où m'arrêter, tellement la liste pourrait aller loin. Une dernière petite chose, avant de fermer cette très très longue conférence, euh, c'est pas maintenant qu'il faut commencer à baisser les bras. Je me souviens toujours à quel point il était précis, euh, parfois de prendre un dessin plutôt que et utile plutôt que de prendre des mots, et parfois certaines choses peuvent aller plus vite pour tout raconter. J'oublie jamais, j'oublierai jamais vraiment ce dessin du dessinateur français André Franquin qui nous a quitté il y a quelques années, qu'il a qu a fait en 1977. C'est la couverture intérieure d'un bouquin d'humour noir extrêmement sombre qui s'appelle Las en anglais, idée noire en français, et euh, en gros, ça montre un couple et le reste des pages est entièrement noir. Hein. C'est tout petit dans un coin, tout le reste de la page est noir. Qui monte un morceau fragment explosé de la terre et ils disent en gros, t'en fais pas, je suis là. Et ils se tiennent l'un dans les bras et ils se disent, quelqu'un va quelque part organiser quelque chose. On sent monter l'angoisse, on sent qu'il reste la petite maison de banlieue bien vendue, bien typée avec la maison, le garage et les fenêtres et qu'il reste pas grand-chose. Et euh, ils disent, c'est bizarre, on commence à moins bien respirer. On va rentrer la nuit porte conseil. On se doute qu'il n'y aura pas beaucoup de nuit derrière pour eux. En tout cas, ce sera la dernière. Quoi. Ce, ce cartoon hautement dépressif euh, montre le, le sentiment, l'émotion, la sensation qu'on pourrait avoir aujourd'hui. Euh, parce que cette émotion est celle que n'importe quel être humain normalement constitué pourrait ressentir. Cette sensation que vous avez... Euh, en ce moment, elle a un nom, c'est un néologisme qu'on appelle la solastalgie. C'est l'émotion et la détresse existentielle qui sont causées par les changements environnementaux. On pourrait être euh, tenu et, et, et tenté de, de fondre, d'être de, écroulé par cette, euh, cette conscience malheureuse, telle que la définissaient euh, les philosophes euh, George Hegel ou Benjamin Fondane, euh, comme plein d'autres, de différentes manières et dans différentes perspectives la dépression paradoxale quelque part d'être euh, complètement au courant de la situation dans laquelle on est, les challenges auxquels on fait face et de notre incapacité à changer quoi que ce soit de l'autre côté. Euh, mais il ne faudrait pas laisser ce, cette sensation vous envahir. La demi-bonne nouvelle que je peux vous dire, c'est qu'on n'a pas le pouvoir et la capacité de détruire la planète Terre, même si on voulait. On n'a pas même pas le pouvoir pour ruiner sa surface. On n'a même pas les matériaux pour aller faire la guerre aussi loin que ça. Et il n'y a absolument aucun calcul ou aucune prévision pour lesquelles, en tout cas, la vie sur Terre et la biosphère meurent, même pas tous et tous les gens, tous les humains euh, d'entre nous. Ça va probablement être un gros challenge, un challenge très dur, mais ça n'a pas besoin d'être apocalyptique. Et au passage... Je continue de rappeler tous les gens, tous les jours qui, qui existent aux gens de notre monde, que ce monde et ce qui nous entoure, la manière dont on organise les métriques humaines pour mesurer le développement en tout cas, nous montre que tout va mieux tous les jours. Ce qui est complètement paradoxal avec ce que je viens de dire à côté. Hein. C'est pas vraiment visible si vous habitez dans des pays dits développés, mais pour les autres, croyez-le, ça l'est. J'ai parlé essentiellement du monde, euh, essentiellement à travers un, un trou de serrure en fait, qui est en fait une énorme porte, celui de la physique et du monde numérique. Mais comme j'ai dit, si vous récupérez tout, euh, tous les résultats, vous devrez gérer tous les résultats de la physique euh, pour faire le pire, effectivement, vous aurez un monde qui sera encore pire. Heureusement, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui sur plein 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 d'autres métriques, l'éducation, le traitement fait aux femmes, la justice, l'égalité, la pauvreté extrême, etc. Je sais, ça a l'air dingue, vous allez croire c'est impossible à, à croire, mais vous m'avez cru jusque-là, vous pouvez me croire, et surtout, vous pouvez croire Hans et Ola Rosling et leur talk, leurs conférence brillante, qu'ils ont fait plein de fois sur Internet, il y en a une chez TED notamment, pour vous en parler plus et pour vous rendre compte à quel point on peut parfois se laisser emporter par des mauvais sentiments. J'ai pas le temps maintenant de vous la montrer, mais vous devriez vraiment, je l'ai mise en lien dans les liens, vous devriez vraiment aller voir cette conférence. Vous allez s'ouvrir vraiment beaucoup. Je vous jure, elle est absolument, absolument géniale cette conférence. Il y a, il y a eu euh, à travers le temps une idée qu'on a appelée la légende du colibri, qui vient euh, de l'amérindien, des légendes amérindiennes, et qui persiste à travers les âges et dit la chose suivante, nous raconte une petite histoire, nous narre quelque chose de simple, qui dit qu'une fois il y a eu un feu dans une forêt et que tous les animaux commençaient à partir, à fuir, en courant, en volant, jusqu'à trouver un bord une bordure de rivière. Et il y a un petit colibri qui a pris deux trois gouttes dans son petit bout de bec et qui s'est dit Je vais les prendre de la rivière la plus proche et les déverser au-dessus du feu immense encore et encore et encore. Et un des animaux lui dit Mais qu'est-ce que tu fais T'es tellement petit, fragile, tu vas brûler en deux secondes. Et le colibri répond Je fais juste ma part, je fais juste ce que je peux. Alors vous voyez. Je ne lis pas beaucoup de bouquins parce que je suis quelqu'un d'assez occupé et que je lis que des bouquins assez compliqués sur des sujets scientifiques. Et je trouve que je suis trop facilement influençable. Donc j'aime bien essayer de penser plus par moi-même sans jamais me vanter de ce que je pense. Justement, c'est ça qui est assez difficile comme possibilité. Et ce n'est pas la plus facile des manières de penser. Mais de temps en temps, je tombe sur des citations que j'aime bien et qui résument de grandes idées. En 2009, il y a un philosophe français et un poète français qui s'appelait Édouard Glissant qui nous a laissé cette phrase que j'aime beaucoup et que je réutilise beaucoup, qui dit ⁇ Agis en ton lieu et pense avec le monde ⁇ Je pense que c'est ce que j'essaie de faire, de changer mes habitudes petit à petit, qu'on sait que c'est juste une vieille histoire, tout ça, et que ça ne marche pas, mais on essaie de reconsidérer petit à petit comment on construit notre civilisation. J'ai arrêté de bouffer de la viande de vache. J'essaie de devenir vegan, j'y suis pas, calmez-vous, hein, mais voilà, j'essaie de me calmer un peu. J'ai arrêté et j'ai annulé définitivement mes rêves de voiture sportive. Euh, la prochaine sera Energy Mix parce que c'est ce que j'ai trouvé de mieux et probablement pas neuve, je verrai aussi. J'essaie de trouver une maison depuis des années et maintenant les émissions de gaz à effet de serre sont devenues dans mes principaux critères pour l'acheter. J'ai divisé par 1,3 ma consommation électrique dans 10 ans. Avec de meilleurs moniteurs, avec euh, de l'éclairage à LED, j'ai changé mon smartphone seulement tous les 4 ans pour l'instant. Euh, J'essaie d'atteindre 6 mais c'est devenu très très difficile. J'ai viré absolument tous mes mails, je me suis désinscrit de tout, je reçois quasiment plus rien. Mon email de poubelle ne reçoit quasiment plus aucun spam la journée, et plus aucun mail non sollicité. Et euh, je trie maintenant 100% des déchets que j'ai chez moi, ce qui était beaucoup plus que ce que je pensais faire avant, qui était déjà beaucoup mais pas assez. Ça fait pas grand chose, mais je trouve des nouvelles idées tous les jours. Alors vous, je sais pas, vous avez sûrement des nouvelles idées. Ce qui est sûr et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on va pas résoudre aujourd'hui tout avec des substituts. On va pas avoir la possibilité de dire le monde de demain sera comme avant, mais à la place on fera ça. Ça on le sait déjà. Oui, je sais, vous avez le générique de Game of Thrones dans la tête maintenant, j'y suis pour rien. On sait qu'on n'arrivera pas à remplacer le monde actuel et sa pollution et sa fatigue par un autre monde similaire. On sait qu'on va devoir reconstituer euh, les choses et reconsidérer comment on, on vit et comment on avance. Parce que oui, on va avancer. On va pas s'arrêter ici. Il oh, y a plein de choses encore je pourrais vous dire qui sont extraordinaires, magnifiques, euh, à couper le souffle et qu'on fait en ce moment même dans le monde entier, du, au milieu de cette époque absolument extraordinaire. Et vous n'avez probablement pas idée de tout ce qu'on arrive à faire en ce moment pendant que je parle. Et moi-même, pas toujours. Franchement, même pas du tout des fois, pour être honnête. On commence à, à peine à comprendre notre univers, comment il a démarré, comment il avance, comment il fonctionne. On a fait réexister des anciennes particules qui n'avaient pas existé depuis des milliards d'années, euh, qui avaient disparu depuis l'univers primordial. On a commencé à enquêter sur la matière qu'on pense non baryonique, la matière noire, l'énergie noire, des choses qu'on ne peut pas percevoir, avec lesquelles on ne peut pas interagir. On a commencé... À étudier les trous noirs. On a juste, il n'y a pas longtemps, trouvé de la matière sur la Terre qui est plus vieille que la Terre elle-même. On a détecté et validé la théorie d'Einstein sur les ondes gravitationnelles de 1916, il y a à peine une poignée d'années. Des oscillations dans les courbures de l'espace-temps. On a fait tellement de choses extraordinaires qu'on se tient ici, aujourd'hui, à ces balbutiements de notre connaissance à cette haube de notre réinvention, à ce qui pourrait être assimilé à peine à une ère préhistorique pour les humains du siècle prochain, il faut faire face à nos erreurs, réorganiser notre civilisation comme on l'a toujours fait, collectivement, par l'aide mutuelle. Sauf qu'aujourd'hui, on ne peut plus repousser cette action. C'est pourquoi aujourd'hui, on se tient là, à cet endroit précis que moi j'ai appelé le bord du monde. Ce monde qui, pour l'instant, comme je le répète à chaque fois, nous permet d'avoir des serveurs de sauvegarde, mais pas de planète de sauvegarde. Et pour finir, vous aurez ici toutes les références que j'ai utilisées pour cette conférence. Je les garde à disposition, j'essaierai de les mettre en lien, de mettre les slides sur des partages, plateformes, etc. Oui, j'ai eu pas mal de boulot pour faire une conférence de 6, 7 heures, 7 heures comme celle-là. J'ai 6 mois de boulot derrière et à peu près 500 heures de boulot pour assembler et composer tout ça, qui est évidemment quelque chose qui est loin d'être parfait. Et comme vous vous en doutez, c'est un sujet qui est pas facile et qui demande beaucoup de travail. Et la dernière partie, j'espère que ça sera lisible. Peu importe, on a atteint la fin de cette conférence pour le moment. Je suis assez satisfait. Euh, parce que sourcer, assembler, comprendre... Tout ce qui est dans cette conférence m'a pris des mois, des mois, des centaines d'heures de taf. Et pour faire tout ça, je vous le dis, j'étais tout seul. Euh, ce qui pouvait l'imaginer, en fait, demande beaucoup de motivation. Maintenant que vous avez compris, la meilleure chose à faire, c'était d'être informé. Ce pourquoi je vous encourage à partager ceci, évidemment. Mais si vous ne voulez pas partager ma conférence, partagez dans d'autres. Il y en a plein, j'en ai laissé dans les références aussi. Maintenant... Vous savez pas où on va, vous savez pas où arriver, mais vous savez où vous commencez. Maintenant, vous partagez aussi une part collective de notre conscience et du numérique et de votre responsabilité physique et numérique. Je suis plus que satisfait, heureux et apaisé que vous soyez toujours là, si vous êtes toujours là, <laughs> que vous ayez pris votre temps précieux et unique qui vous est donné sur Terre pour regarder ça, que nous ayons partagé ensemble cette fraction de temps un peu fugitive malgré sa longueur. Et que les atomes qui nous composent aient pris le temps de s'occuper des atomes dont ils ont besoin pour exister et persister. Tout ça, comme l'a dit Carl Sagan une fois, sur un tas de poussière suspendu à un rayon de soleil. De la part de l'être humain qui marche sur la même planète que vous. Je vous remercie pour votre attention. On se revoit dans le cosmos.